Voici « Presque disparu. la fille au père », livre 1, écrit par Blake Pierce, narré par Soraya Garay. Chapitre 1 Cassie Val, 23 ans, était assise sur l'une des deux chaises en plastique de la salle d'attente de l'agence au père, les yeux fixés sur les affiches et les cartes sur le mur d'en face. Il y avait un poster de la Tour Eiffel juste au-dessus du logo Kitsch de Maureen's European Au Pairs et un autre de la porte de Brandebourg. Un café dans une cour pavée, un village pittoresque surplombant une mer azur. Des paysages de rêve, des lieux où elle avait envie d'aller. Le bureau de l'agence était exigu et étouffant. La clim vibrait inutilement, pas la moindre bouffée d'air ne provenait des évents. Cassie essuya discrètement une goutte de sueur coulant sur sa joue. Elle ignorait combien de temps elle pourrait encore supporter cela. La porte du bureau s'ouvrit soudain et elle sursauta, saisissant son dossier sur l'autre chaise. Mais elle sentit son cœur se briser en voyant que ce n'était qu'une autre candidate, une grande blonde mince, qui dégageait toute la confiance que Cassie aurait souhaité avoir. Elle souriait de satisfaction, tenant une liasse de formulaires officiels, et elle jeta à peine un coup d'œil à Cassie en passant. Son estomac se serra. Elle consulta ses documents, se demandant si elle y parviendrait aussi, ou si elle en sortirait déçue et honteuse. Elle savait que son expérience était lamentablement insuffisante, et qu'elle n'avait pas les qualifications nécessaires pour s'occuper d'enfants. Elle avait essuyé un refus de l'agence de croisière qu'elle avait contactée la semaine précédente. Ils avaient dit que sans expérience, ils ne pourraient même pas l'inscrire dans leur registre. S'il en était de même ici, elle n'aurait aucune chance. Cassandra Val? Je suis Maurine. Entrez, je vous prie. Cassie leva la tête. Une femme aux cheveux gris, en costume foncé, attendait sur le seuil. De toute évidence, c'était la patronne. Cassie bondit sur ses pieds, ses papiers soigneusement organisés débordant du dossier. Tout en les rassemblant, les joues en feu, elle se précipita dans la salle d'entretien. Tandis que Maureen les parcourait, sourcils froncés, Cassie se mit à arracher ses cuticules avec ses ongles avant de croiser les mains, la seule façon d'arrêter ce tic nerveux. Elle essaya de respirer profondément pour se calmer. Elle se dit que la décision de cette femme ne serait pas son unique moyen de s'en sortir. Il y avait d'autres façons de s'échapper et de prendre un nouveau départ. Mais pour l'instant, il semblait que ce soit le seul restant. La Compagnie de Croisière lui avait donné un nom catégorique. Enseigner l'anglais, son autre idée, était impossible sans les qualifications adéquates, et les obtenir était trop onéreux. Il lui faudrait économiser pendant un an de plus pour avoir l'espoir de commencer, et, à l'heure actuelle, elle n'avait pas le temps de se le permettre. La semaine dernière, ce choix lui avait été arraché. Alors, Cassandra, vous avez grandi à Millville, dans le New Jersey? Votre famille y vit toujours? demanda finalement Maureen. Je vous en prie, appelez moi Cassie, répondit elle. Et non, ils ont déménagé. Cassie serra ses mains plus fort, inquiète de la direction que prenait l'entretien. Elle ne s'était pas attendue à ce qu'on l'interroge en détail sur sa famille, mais maintenant elle se rendait compte qu'ils auraient bien évidemment besoin d'informations sur la vie familiale d'une postulante, car les filles au père vivent et travaillent chez les clients. Elle devait réfléchir rapidement, car bien qu'elle ne veuille pas mentir, elle craignait que la vérité ne compromette sa candidature. Et votre sœur aînée? Vous dites qu'elle travaille à l'étranger? Au soulagement de Cassie, Maureen était passée à la section suivante. Elle avait réfléchi à ce qu'il fallait dire si on lui posait la question, faisant avancer sa propre cause d'une manière qui n'exigeait aucun détail vérifiable. Les voyages de ma sœur m'ont certainement motivée à accepter un poste à l'étranger. J'ai toujours voulu vivre dans un autre pays et j'adore l'Europe, surtout la France, car je parle assez bien la langue. Vous l'avez étudiée Oui, pendant deux ans, mais j'étais habituée à la langue avant ça. Ma mère a grandi en France et faisait de la traduction en freelance de temps en temps quand j'étais plus jeune. Alors ma sœur et moi avons grandi avec une bonne compréhension du français parlé. Maureen posa une question en français. Qu'espérez-vous acquérir en travaillant comme fille au père Cassie fut heureuse de pouvoir répondre avec aisance. Mieux connaître la vie dans un autre pays et améliorer mes compétences linguistiques. Elle espérait que sa réponse impressionnerait Maureen, mais celle ci resta impassible en finissant de parcourir les documents. Vous habitez toujours chez vos parents, Cassie? Retour à la vie de famille. Maureen se doutait elle qu'elle cachait quelque chose? Il faudrait qu'elle réponde prudemment. Partir à seize ans, comme elle l'avait fait, attirerait sûrement l'attention d'un recruteur. Pourquoi si jeune? Y avait il des problèmes à la maison? elle devait brosser un tableau plus joli qui laisse entrevoir une vie de famille normale et heureuse. Je vis seule depuis l'âge de vingt ans, répondit elle, se sentant rougir de culpabilité. Et en travaillant à mi temps. Je vois que vous avez une recommandation de primi. C'est un restaurant? Oui, j'étais serveuse là bas ces deux dernières années. Ce qui était vrai, heureusement. Avant cela, elle avait occupé une pléiade d'autres boulots, et même un court passage dans un boui boui, alors qu'elle peinait à payer la part de son loyer ainsi que ses études à distance. Primi, son emploi le plus récent, avait été le plus agréable. L'équipe du restaurant ressemblait à la famille qu'elle n'avait jamais eue, mais il n'y avait pas d'avenir là bas. Son salaire était bas, et ses pourboires guère meilleurs. Le commerce dans cette partie de la ville était difficile. Elle avait prévu de passer à autre chose quand le moment serait venu, mais quand sa situation avait empiré, c'était devenu urgent. De l'expérience en matière de garde d'enfants? Cassie sentit son ventre se nouer tandis que Maureen la détaillait par dessus ses lunettes. J'ai j'ai travaillé dans une garderie pendant trois mois avant de commencer chez Primi. La référence se trouve dans le dossier. Ils m'ont donné une formation de base sur la sécurité et les premiers soins, et ils ont vérifié mes antécédents. Bégaya-t-elle, espérant que ce serait suffisant. Il ne s'agissait que d'un poste provisoire, en remplacement d'une personne en congé maternité. Elle n'avait jamais pensé que ce serait un tremplin vers un débouché ultérieur. J'ai également organisé des fêtes pour enfants au restaurant. Je suis une personne très sympathique. Je veux dire, je m'entends bien avec les autres et je suis patiente. Maurine serra les lèvres. Quel dommage que votre expérience ne soit pas plus récente. « De plus, vous n'avez pas de certification officielle en matière de garde d'enfants. La plupart des familles exigent des qualifications ou, tout au moins, plus d'expérience. Ça va être difficile de vous placer avec si peu. » Cassie la regarda avec désespoir. Elle devait le faire quoi qu'il en coûte. Le choix était clair. S'enfuir ou se laisser piéger dans un cycle de violence qu'elle croyait avoir fui à jamais en quittant la maison. Les bleus sur son bras avaient mis quelques jours à s'épanouir, sombrement marqués, de sorte qu'elle pouvait voir chaque coup de poing qu'il lui avait asséné. Son petit ami Zane, qui avait promis à leur deuxième rendez-vous qu'il l'aimait et la protégerait quoi qu'il arrive. Quand les vilaines marques apparurent, elle se souvint, avec une chair de poule picotant sa colonne vertébrale, qu'elle avait eu des bleus presque identiques au même endroit dix ans plus tôt. Ce fut d'abord son bras, puis son cou, et enfin son visage. Également infligé par un prétendu protecteur, son père. Il avait commencé à la frapper à l'âge de douze ans après que Jackie, sa sœur aînée, s'était enfuie. Avant, c'était Jackie la cible de sa colère. Sa présence avait protégé Cassie du pire. Les bleus de Zane étaient toujours là. Il leur faudrait du temps pour s'estomper. Elle portait des manches longues pour les cacher pendant l'entretien et elle avait trop chaud dans le bureau étouffant. Y a-t-il un autre endroit que vous pourriez me recommander demanda t-elle à Morine. Je sais que c'est la meilleure agence locale, mais pourriez vous me suggérer un site web où je pourrais postuler? Je ne peux pas recommander de site web, dit Morine d'un ton ferme. Trop de candidats ont eu de mauvaises expériences. Certains se sont retrouvés dans une situation où leurs horaires de travail n'étaient pas respectés, ou bien on s'attendait à ce qu'ils fassent des tâches ménagères subalternes en plus de s'occuper des enfants. C'est injuste pour toutes les personnes concernées. J'ai aussi entendu parler de filles au père qui ont été maltraitées d'autres façons. Alors, non. S'il vous plaît, y a t-il quelqu'un dans vos registres qui pourrait considérer ma candidature? Je suis une travailleuse acharnée et prête à apprendre. Je peux facilement m'intégrer. S'il vous plaît, donnez moi une chance. Maureen se tut un moment, puis tapota sur son clavier en fronçant les sourcils. Votre famille, que pense t-elle du fait que vous voyagiez pendant un an? Avez-vous un petit ami Quelqu'un que vous laissez derrière vous J'ai rompu avec mon petit ami récemment. Et j'ai toujours été très indépendante, ma famille le sait. Zeyn avait pleuré et s'était excusée après lui avoir cogné le bras, mais elle n'avait pas cédé, pensant plutôt à l'avertissement de sa sœur qu'elle lui avait donné il y avait longtemps et dont la véracité avait été prouvée depuis lors. Un homme ne frappe jamais une femme, même une seule fois. Elle avait fait ses valises et emménagé chez une amie. Pour l'éviter, elle avait bloqué ses appels et changé l'horaire de ses journées de travail. Elle espérait qu'il accepterait sa décision et la laisserait tranquille, tout en sachant au fond d'elle-même qu'il ne le ferait pas. La rupture aurait dû être l'idée de Zane, pas la sienne. Son égo ne lui permettait pas d'être rejeté. Il était déjà allé au restaurant à sa recherche. La gérante lui avait dit qu'elle avait pris deux semaines de congé et était partie en Floride. Cela lui avait fait gagner du temps mais elle savait qu'il comptait les jours. Il lui restait une semaine avant qu'il ne la traque à nouveau. Les États Unis semblaient trop petits pour lui échapper. Elle voulait un océan, un grand océan entre eux, parce que le pire de tout était sa crainte qu'elle ne s'affaiblisse, lui pardonne et lui donne une seconde chance. Maureen termina de vérifier la paperasse et posa quelques questions classiques que Cassie trouva plus faciles. Ses passe-temps, si elle prenait des médicaments pour des maladies chroniques, si elle avait des exigences alimentaires ou des maladies. Je n'ai pas d'exigences alimentaires ou d'allergies, ni de problèmes de santé. Cassie espérait que ces médicaments contre l'anxiété ne comptaient pas comme un traitement chronique. Il valait mieux ne pas les mentionner, décida-t-elle, car elle était certaine qu'il serait un énorme signal d'alarme. Maureen griffonna un mot sur le dossier, puis elle demanda Que feriez-vous si les enfants dont vous avez la charge étaient méchants ou désobéissants? Comment géreriez-vous ça Cassie prit une longue respiration. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait de réponse universelle. Si un enfant désobéit parce qu'il court vers une route dangereuse, ça exigerait une approche différente que s'il ne veut pas manger ses légumes. Dans le premier cas, il s'agirait d'abord d'une question de sécurité et de mettre l'enfant à l'abri du danger le plus rapidement possible. Pour le second, je raisonnerais et négocierai. Pourquoi tu ne les aimes pas? C'est l'apparence ou le goût. Veux tu goûter une bouchée? Après tout, nous passons tous par des phases alimentaires, et généralement ça passe en grandissant. Maureen semblait satisfaite de la réponse, mais les questions suivantes furent plus difficiles. Que ferez vous si les enfants vous mentent? Par exemple, s'ils vous disent qu'ils ont le droit de faire quelque chose que les parents ont interdit. Je dirai que ce n'est pas permis, et leur dirai pourquoi, si je le sais. Je suggérerais qu'on parle aux parents ensemble et qu'on discute des règles en famille pour les aider à comprendre pourquoi c'est important. Cassie avait l'impression de marcher sur une corde raide, espérant que ses réponses étaient acceptables. Comment réagiriez-vous, Cassie, si vous étiez témoin d'une dispute conjugale En vivant au sein d'une famille, il y aura des moments où les gens ne s'entendront pas. Cassie ferma les yeux un instant, repoussant les souvenirs déclenchés par les paroles de Maurine. Les cris, les bris de glace, les voisins qui s'engueulaient méchamment, une chaise coincée sous la poignée de la porte de sa chambre, la seule protection précaire qu'elle avait pu trouver. Mais alors qu'elle allait dire qu'elle s'enfermerait avec les enfants dans une pièce sécurisée et qu'elle appellerait immédiatement la police, Cassie se rendit compte que Maureen ne parlait pas d'une bagarre de ce genre. Pourquoi penserait-elle à ça Elle pensait évidemment à une dispute verbale, quelques mots lancés sur le coup de la colère une friction temporaire plutôt qu'une destruction finale. J'essaierai de garder les enfants hors de portée de voix, répondit elle en choisissant ses mots avec soin, et je respecterai l'intimité des parents en restant bien à l'écart. Après tout, les disputes font partie de la vie, et une fille au père n'a pas le droit de prendre parti ou de s'impliquer. Seulement maintenant elle eut enfin droit à un petit sourire. Bonne réponse, approuva Maureen. Elle vérifia de nouveau son ordinateur et hocha la tête, comme si elle confirmait une décision qu'elle venait de prendre. Il n'y a qu'une seule option que je puisse vous offrir un poste dans une famille française. Le cœur de Cassie bondit, mais retomba quand Maurine ajouta Leur dernière fille au père est partie inopinément au bout d'un mois, et ils ont du mal à trouver une remplaçante. Cassie se mordit les lèvres. Que la fille au père ait démissionné ou qu'elle ait été renvoyée, elle ne le savait pas. Mais elle ne pouvait pas se permettre qu'il lui arrive la même chose. Avec les frais d'agence et le billet d'avion, elle dépenserait toutes ses économies dans cette aventure. Quoi qu'il en coûte, il faudrait qu'elle fasse en sorte que ça marche. Maureen ajouta C'est une famille riche dans une belle maison, pas en ville. C'est un manoir à la campagne, dans un grand domaine. Il y a un verger et un petit vignoble non commercial, et aussi des chevaux, bien que des connaissances équestres ne soient pas requises. Cependant, vous aurez l'occasion d'apprendre à monter à cheval, quand vous y serez, si vous le souhaitez. J'adorerais ça, dit Cassie. L'attrait de la campagne française et la promesse des chevaux rendaient le risque plus intéressant. Et une famille riche signifiait sûrement une meilleure sécurité d'emploi. Peut-être que la dernière fille au père n'avait pas voulu faire d'efforts. Maureen ajusta ses lunettes avant de noter quelque chose sur l'affiche de Cassie à présent je dois souligner qu'il n'est pas facile de travailler dans toutes les familles certaines sont très exigeantes d'autres franchement difficiles la réussite de votre travail reposera sur vos épaules je ferai de mon mieux pour réussir démissionner d'une mission avant la fin de l'année n'est pas acceptable vous vous exposerez à des frais d'annulation substantiels et vous ne travaillerez plus jamais pour nous les détails sont stipulés dans le contrat maureen tapota son stylo sur la page je n'imagine pas que cela puisse arriver, répondit Cassie avec détermination. Bien. Le dernier point que nous devons aborder concerne le calendrier. Oui. Dans combien de temps partirai je? demanda Cassie. Son anxiété revint au galop tandis qu'elle se demandait combien de temps encore elle aurait besoin d'esquiver et de se terrer. Ça prend habituellement six semaines environ, mais la demande de cette famille est très urgente, et nous allons donc l'accélérer. Si les choses avancent comme prévu, vous vous envolerez d'ici une semaine. Est ce que ça vous convient? C'est c'est parfait, bégaya t-elle. S'il vous plaît, j'accepte le poste. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça marche, et je ne vous décevrai pas. La femme la fixa longuement et durement, comme si elle la cernait une dernière fois. Je l'espère bien, dit elle. Chapitre II Les aéroports ne sont qu'une question d'adieux, songea Cassie. Des adieux précipités, un environnement impersonnel qui nous prive des mots que l'on voulait vraiment dire, ainsi que du temps de les énoncer correctement. Elle avait insisté pour que la copine qui l'avait amenée à l'aéroport la dépose plutôt que de venir avec elle. Une accolade avant de sortir de la voiture, c'était rapide et facile. Mieux qu'un café cher et une conversation embarrassante qui se tarit à l'approche de l'heure du départ. Après tout, elle voyageait seule, laissant derrière elle tout ce qu'elle connaissait. Il était logique de commencer ce voyage le plus tôt possible. En poussant le chariot à bagages dans l'aérogare, Cassie se sentit soulagée d'avoir atteint ses objectifs jusqu'ici. Elle avait obtenu la mission, le plus important de tous. Elle avait payé le vol et les frais d'agence, son visa avait été délivré en procédure accélérée, et elle était à l'heure pour l'enregistrement. Ses effets personnels étaient emballés selon la liste fournie. Elle était contente du sac à dos bleu vif qu'on lui avait donné avec le logo Morin's au Pairs, car il n'y aurait pas eu de place dans sa valise pour tous ses vêtements. Dorénavant, jusqu'à son arrivée à Paris, elle était sûre que tout se passerait bien. Et puis elle s'arrêta net, le cœur battant quand elle le vit. Il se tenait près de l'entrée du terminal, dos au mur, les pouces fourrés dans les poches de la veste en cuir qu'elle lui avait donnée. Sa taille, ses cheveux bruns en épis et sa mâchoire agressive le rendaient facile à repérer pendant qu'il scrutait la foule. Zane. Il avait dû découvrir qu'elle partait à ce moment là. Divers amis lui avaient dit qu'il les avait appelés, leur demandant où elle était et vérifiant l'histoire de la Floride. Zane pouvait être manipulateur, et tout le monde ne connaissait pas sa situation. Quelqu'un avait dû lui dire innocemment la vérité. Avant qu'il ne la repère, elle fit pivoter le chariot autour d'elle, et rabattit la capuche de son survêtement sur sa tête pour cacher ses cheveux ondulés aux burn. Elle se précipita dans l'autre sens, conduisant le chariot derrière un pilier hors de sa vue. Le comptoir d'enregistrement d'Air France se trouvait à l'autre bout du terminal, elle ne pouvait pas passer sans qu'il la voie. Réfléchis, Cassie, se dit-elle. Dans le passé, Zeyn l'avait félicité pour sa capacité à préparer rapidement un plan dans une situation délicate. Tu es vive d'esprit, avait-il dit. C'était au début de leur relation. À la fin, il l'accusait amèrement d'être insidieuse, sournoise, trop intelligente pour son propre bien. Il était temps d'être trop intelligente alors. Elle prit une grande respiration, cherchant ses idées. Zane se tenait près de l'entrée du terminal. Pourquoi Il aurait été plus facile d'attendre au comptoir d'enregistrement où il serait sûr de la repérer. Donc cela voulait dire qu'il ignorait quelle compagnie aérienne elle prenait. Celui ou celle qui lui avait donné l'information ne le savait pas ou ne l'avait pas dit. Si elle trouvait un autre moyen d'accéder au comptoir, elle pourrait se présenter à l'enregistrement avant qu'il ne vienne la chercher. Cassie déchargea ses bagages, portant le lourd sac à dos sur ses épaules et traînant sa valise derrière elle. Il y avait un escalator à l'entrée du bâtiment elle était passée devant en entrant. Si elle le prenait jusqu'au dernier étage, elle espérait en trouver un qui descendrait, ou un ascenseur, à l'autre bout. Abandonnant le chariot à bagages, elle se dépêcha de revenir par le chemin qu'elle avait emprunté pour prendre l'escalator. Celui à l'autre bout était cassé, alors elle descendit les marches abruptes, traînant sa lourde valise derrière elle. Le comptoir d'enregistrement d'Air France était à une courte distance, mais à son grand désarroi il y avait déjà une longue et lente file d'attente. Tirant sa capuche sur son front, elle rejoignit la file d'attente, prit un livre de poche dans son sac à main, et se mit à lire. Elle ne comprenait pas les mots, et la capuche était étouffante. Elle aurait voulu l'enlever pour refroidir la sueur dans son cou. Or, elle ne pouvait prendre un tel risque. Ses cheveux vifs seraient aussitôt repérables. Mieux valait rester cachée. Une main ferme lui tapota l'épaule. Elle pivota, haletante, fit face au regard surpris d'une grande blonde à peu près de son âge. Désolée de t'avoir fait peur, dit-elle. Je suis Jess. J'ai remarqué ton sac à dos et je me suis dit que je devrais dire bonjour. Ah oui, Maureen Saupers. Tu prends l'avion pour une mission demanda Jess. Oui. Moi aussi. Tu veux voir si la compagnie aérienne peut nous asseoir ensemble? On pourrait le demander à l'enregistrement. Pendant que Jess parlait du temps qu'il faisait en France, Cassie jeta un coup d'œil nerveux autour du terminal. Elle savait que Zane n'abandonnerait pas facilement, pas après avoir conduit jusqu'ici. Il voudrait quelque chose de sa part, des excuses, une promesse. Il la forcerait à venir avec lui pour un pot d'adieu, et lui chercherait querelle. Il s'en ficherait si elle arrivait en France avec de nouveaux bleus, ou si elle ratait complètement son vol. Et puis elle le vit. Il se dirigeait vers elle, à quelques guichets de là, scrutant attentivement chaque queue pour la chercher. Elle se retourna vivement, au cas où il sentirait son regard. Avec une lueur d'espoir, elle se rendit compte qu'elles avaient atteint le comptoir. Madame, vous allez devoir enlever ça. Le réceptionniste indiqua la capuche de Cassie. À contre cœur, elle la rabattit. Et casse! entendit-elle crier Zane. Elle se figea, sachant qu'une réponse serait catastrophique. Maladroite et nerveuse, elle fit tomber son passeport et se précipita pour le ramasser. Son lourd sac à dos bascula par-dessus sa tête. Un autre appel, et cette fois, elle jeta un coup d'œil derrière elle. Il l'avait vue et se frayait un chemin à travers la file d'attente en jouant des coudes. Les passagers étaient fâchés. Elle entendait des voix s'élever. Zayn était en train de provoquer un remue-ménage. Nous aimerions nous asseoir ensemble, si possible, dit Jess au réceptionniste. Et Cassie se mordit les lèvres à cause du délai supplémentaire. Zayn cria de nouveau et elle se rendit compte, le ventre noué, qu'il allait l'atteindre d'un instant à l'autre. Il jouerait de son charme et la supplierait de lui donner une chance de s'exprimer. Lui assurerait que ça ne prendrait qu'une minute pour lui dire en privé ce qu'il avait sur le cœur. Son but, elle le savait par expérience, serait de l'éloigner et qu'elle se retrouve seule. Et là, le charme s'évanouirait. C'est qui ce type demanda Jess avec curiosité. Il te cherche C'est mon ex-petite ami, murmura Cassie. J'essaie de l'éviter. Je ne veux pas qu'il cause d'ennuis avant mon départ. Mais il cause déjà des ennuis. Jess vit volte-face, furieuse. Sécurité! cria-t-elle. Aidez-nous, arrêtez cet homme! Galvanisé par les cris de Jess, un des passagers empoigna la veste de Zane qui le bousculait. Zane glissa sur le carrelage, battant l'air de ses bras, entraînant un poteau avec lui dans sa chute. Tenez-le! supplia Jess. Sécurité, vite! Avec un vif soulagement, Cassie découvrit que la sécurité avait effectivement été alertée. Deux policiers de l'aéroport se précipitaient vers la queue. Ils allaient arriver à temps avant que Zane puisse l'atteindre ou même s'enfuir. Je suis venu dire au revoir à ma petite amie, messieurs les agents, balbutia Zane. Mais ses tentatives de charme n'eurent aucun effet sur les policiers. Cassie. Lança t-il alors qu'un agent saisissait son bras. Au revoir. Ce n'est pas un adieu. Cria t-il tandis que les policiers l'emmenaient. Je vais te revoir. Plutôt que tu ne le penses, tu ferais mieux de prendre soin de toi. Elle capta l'avertissement dans les dernières paroles de Zane, mais pour l'instant, il s'agissait de menaces en l'air. J'avais aussi un petit ami toxique, compatit Jess. Je sais combien ils peuvent être possessifs. Ils collent comme du velcro. Ça a été un plaisir de pouvoir l'arrêter. Passons le contrôle des passeports avant qu'il ne trouve un moyen de revenir. Je te dois un verre. Qu'est-ce que tu préfères Un café, une bière ou du vin Du vin, bien sûr dit Jess alors qu'elle franchissait les portes. Alors, où vas-tu en France? demanda Cassie après avoir commandé le vin. Cette fois, je vais dans une famille à Versailles, près du château, je crois. J'espère que j'aurai l'occasion d'aller le visiter quand j'aurai un jour de congé. Tu as dit cette fois-ci. As-tu déjà été en mission auparavant? Oui, mais ça n'a pas trop bien marché. Jess fit tomber un glaçon dans son verre. La famille était épouvantable. En fait, ils m'ont dissuadé de passer à nouveau par Maureen Saupers. J'ai choisi une autre agence cette fois. Mais ne t'inquiète pas, reprit elle hâtivement. Je suis sûre que tout ira bien pour toi. Maureen doit avoir quelques bons clients dans ses registres. Cassie eut soudain la bouche sèche. Elle prit une grande gorgée de vin. Je pensais qu'elle était digne de confiance. Je veux dire son slogan est la première agence européenne. Ça c'est juste du marketing? rigola Jess. D'autres personnes m'ont dit le contraire. Et toi, qu'est ce qui t'est arrivé? demanda Cassie. Raconte moi. La mission avait l'air bien, bien que certaines questions de Maurine m'aient inquiété. Elles étaient si bizarres que j'ai commencé à me demander s'il y avait des problèmes avec la famille, parce qu'aucune de mes amies au père n'a eu des questions similaires pendant son entretien. Et quand je suis arrivée, eh bien, la situation n'était pas telle qu'annoncée. Comment ça Cassie eut froid dans le dos. Elle aussi avait trouvé les questions de Maurine étranges. Sur le coup, elle avait supposé qu'on posait les mêmes questions à toutes les candidates, que c'était pour tester leurs aptitudes. Et peut-être que ce l'était, mais pas pour les raisons qu'elle avait imaginées. La famille était super toxique, expliqua Jess. Ils étaient irrespectueux et humiliants. Les tâches que j'avais à faire dépassaient largement le cadre de mon travail. Ils s'en moquaient et refusaient de changer. Et quand j'ai dit que je partais, c'est là que c'est vraiment devenu une zone de guerre. Cassie se mordit les lèvres. Elle avait vécu cela en grandissant, elle se souvenait des voix qui s'élevaient derrière des portes closes, des disputes murmurées dans la voiture, d'une tension sur le fil du rasoir. Elle s'était toujours demandé ce que sa mère, si silencieuse, si soumise, si battue, pouvait bien trouver pour se disputer avec son père si agressif et grandiloquent. Ce n'est qu'après la mort de sa mère dans un accident de voiture qu'elle s'est rendue compte qu'il s'agissait de maintenir la paix, de gérer la situation, de protéger Cassie et sa sœur de l'agression qui éclatait de façon imprévisible et sans raison valable. Sans la présence de sa mère, le conflit en gestation avait dégénéré en guerre totale. Elle avait imaginé que l'un des avantages d'être fille au père serait de pouvoir s'intégrer à une famille heureuse qu'elle n'avait jamais eue. Maintenant, elle craignait que ce ne soit le contraire. Elle n'avait jamais réussi à maintenir la paix à la maison. Pourrait-elle un jour gérer une situation instable de la même façon que sa mère Je m'inquiète pour ma famille, avoua Cassie. J'ai aussi eu des questions bizarres pendant l'entretien, et leur précédente fille au père est partie plus tôt que prévu. Que se passera-t-il si je dois faire pareil Je ne veux pas rester si les choses tournent mal. Ne pars pas, sauf en cas d'urgence, l'avertit Jess. Ça provoque un conflit massif, et tu perds beaucoup d'argent. Tu seras responsable de beaucoup de dépenses supplémentaires. Ça m'a presque dissuadée d'essayer à nouveau. J'ai été très prudente avant d'accepter cette mission. Je n'aurais pas pu me le permettre si mon père n'avait pas tout payé cette fois-ci. Elle reposa son verre de vin. On rejoint la porte d'embarquement. On est vers l'arrière de l'avion, donc on sera dans le premier groupe à monter à bord. L'excitation de l'embarquement détourna Cassie de ce que Jess avait dit et une fois assise, elles discutèrent d'autres projets. Quand l'avion décolla, elle sentit son esprit s'élever avec lui parce qu'elle avait réussi. Elle avait quitté le pays, elle avait échappé à Zane et maintenant elle était dans les airs, se dirigeant vers un nouveau départ dans un pays étranger. Ce ne fut qu'après le dîner, lorsqu'elle se mit à réfléchir davantage aux détails de sa mission et aux avertissements que Jess lui avait donnés, que ses doutes réapparurent. Toutes les familles ne peuvent pas être mauvaises, non mais si une agence particulière avait la réputation d'accepter des familles difficiles eh bien, alors les risques seraient plus élevés. Cassie essaya de lire pendant un certain temps, mais elle constata qu'elle ne se concentrait pas sur les mots, et ses pensées s'emballèrent à force de se demander ce qui l'attendait. Elle jeta un coup d'œil à Jess. Après s'être assurée que celle-ci était bien accaparée par son film, Cassie prit discrètement la boîte de pilules dans son sac à main et en avala une avec le fond de son coca light. Si elle n'arrivait pas à lire, elle pourrait au moins essayer de dormir. Elle éteignit sa lumière et inclina son siège. Cassie se retrouva dans sa chambre à l'étage, pleine de courants d'air, blottie sous son lit, adossée contre le mur rugueux et froid. Des bruits sourds, des rires et des braillements d'ivrognes provenaient d'en bas, des libations qui à tout moment allaient devenir violentes. L'oreille tendue, elle attendait les bris de verre. Elle reconnut la voix de son père et celle de sa dernière conquête, Dina. Il y avait au moins quatre autres personnes en bas, peut-être plus. Et puis, par-dessus les cris, elle perçut le grincement du plancher alors que des pas lourds montaient l'escalier. Une voix grave murmura: "Eh hey, ma petite chérie, et du haut de ses douze ans, elle se mit à trembler de terreur. Tu es là, ma fille Elle ferma les yeux de toutes ses forces, se disant que ce n'était qu'un cauchemar, qu'elle était en sécurité au lit, et que les étrangers en bas s'apprêtaient à partir. La porte s'ouvrit lentement en grinçant, et, au clair de lune, elle vit apparaître une grosse botte. Les pieds traversèrent la chambre. Eh hey, fifi un murmure rauque. Je suis venue dire bonsoir. Elle ferma les yeux, priant pour qu'il n'entende pas son souffle haché. Le bruissement du tissu quand il souleva les couvertures. Puis son grognement de surprise en voyant l'oreiller et le manteau qu'elle avait fourré en dessous. Sors de là marmonna-t-il. Elle supposa qu'il regardait les rideaux crasseux qui flottaient dans la brise. Le tuyau d'écoulement suggérant une échappatoire précaire. La prochaine fois, elle trouverait le courage de descendre. Ça ne pouvait pas être pire que de se cacher ici. Les bottes se retirèrent de sa vision. Une explosion de musique jaillit en bas, suivie d'une dispute véhémente. La chambre était silencieuse. Elle frissonnait. Si elle voulait passer la nuit cachée là, il lui fallait une couverture. Elle ferait mieux de l'attraper maintenant. Elle s'éloigna du mur. Quand elle glissa sa main dehors, une main rugueuse la saisit. Te voilà donc! Il l'arracha de sa cachette. Elle s'agrippa à l'armature du lit, le métal froid éraflant ses mains, et se mit à hurler. Ses cris de terreur emplissaient la chambre, emplissaient la maison. Elle se réveilla en sueur, criant, entendant la voix inquiète de Jess. « Et Cassie, est-ce que ça va ?» Les vrilles du cauchemar rôdaient encore, attendant de les faire replonger. Elle sentait les égratignures à vif sur son bras, là où l'armature rouillée du lit l'avait écorchée elle y pressa ses doigts et fut soulagée de trouver une peau intacte. Les yeux écarquillés, elle alluma sa veilleuse pour chasser l'obscurité. Ça va, un cauchemar, c'est tout. Tu veux de l'eau? Du thé? Je peux appeler l'hôtesse de l'air? Cassie allait refuser poliment, mais elle se rappela qu'elle devait reprendre ses médicaments. Si un comprimé ne marchait pas, deux empêcheraient généralement les cauchemars de se répéter. J'aimerais un peu d'eau, merci, dit elle. Tandis que Jess cherchait l'hôtesse du regard, elle avala rapidement une autre pilule. Elle ne chercha pas à dormir davantage. Pendant la descente de l'avion, elle et Jess échangèrent leur numéro de téléphone, et au cas où, elle nota le nom et l'adresse de la famille chez qui Jess allait travailler. Cassie se disait que c'était comme une police d'assurance. Si elle l'avait, elle n'en aurait pas besoin. Elles se promirent qu'à la première occasion, elles visiteraient ensemble le château de Versailles. Alors qu'elle roulait sur la piste de l'aéroport Charles de Gaulle, Jess éclata de rire. Elle montra rapidement à Cassie le selfie que sa famille d'accueil avait pris pour elle en l'attendant. Le couple attrayant et ses deux enfants souriaient, tenant une pancarte portant le nom de Jess. Cassie n'avait reçu aucun message. Maureen lui avait juste dit qu'elle serait accueillie à l'aéroport. La marche vers le contrôle des passeports lui sembla interminable. Un brouhaha de conversations en diverses langues l'entourait. À l'écoute du couple qui marchait à ses côtés, elle réalisa le peu de français parlé qu'elle était capable de comprendre. La réalité était si différente de celle des cours à l'école et des cassettes linguistiques. Elle se sentait effrayée, seule et en manque de sommeil, et elle eut soudain conscience que ses vêtements étaient froissés et humides de transpiration, comparés aux voyageurs français élégamment vêtus autour d'elle. Dès qu'elle récupéra ses bagages, elle fila aux toilettes, enfila un haut propre et se recoiffa. Elle ne se sentait toujours pas prête à rencontrer sa famille et ne savait pas qui l'attendrait. Maurine lui avait dit que la maison était à plus d'une heure de route de l'aéroport, alors peut-être que les enfants n'étaient pas venus. Elle ne devrait pas chercher une grande famille. N'importe quel visage sympathique ferait l'affaire. Mais dans la foule des gens qui la regardaient, elle ne voyait aucune reconnaissance. Bien qu'elle ait placé son sac à dos Morin's au pairs en évidence sur le chariot à bagages, elle marcha lentement de la porte jusqu'au hall des arrivées, cherchant anxieusement quelqu'un qui la repérerait, la saluerait ou l'appellerait. Mais tout le monde là-bas semblait attendre quelqu'un d'autre. Ses mains froides agrippant la poignée du chariot, Cassie déambula dans le hall des arrivées, cherchant en vain, tandis que la foule se dispersait progressivement. Maurine n'avait pas dit quoi faire si cela se produisait. Devrait elle appeler quelqu'un? Pourrait elle au moins utiliser son téléphone en France? Et puis, alors qu'elle faisait un dernier passage frénétique dans le hall, elle le vit. Cassandra Val. Une petite pancarte tenue par un homme maigre, aux cheveux foncés, vêtu d'une veste noire et d'un jean. Debout près du mur, absorbé par son téléphone, il ne la cherchait même pas. Elle s'approcha d'un pas irrésolu. Bonjour, je suis Cassie. Êtes vous? demanda t-elle. Sa voix mourut en s'apercevant qu'elle n'avait aucune idée de qui il s'agissait. Oui, répondit il dans un anglais fortement accentué. Venez par ici. Elle était sur le point de se présenter correctement, de prononcer les paroles qu'elle avait répétées sur son enthousiasme à l'idée de rejoindre la famille, quand elle remarqua la carte plastifiée sur sa veste. Il n'était qu'un chauffeur de taxi, la carte était son laissez passer officiel de l'aéroport. La famille n'avait même pas pris la peine de venir l'accueillir. Chapitre III Le paysage urbain de Paris se déploya sous les yeux de Cassie. Les grandes tours d'appartements et les sombres bâtiments industriels cédèrent peu à peu la place à des banlieues boisées l'après-midi était froid et gris avec des averses impromptues et diluviennes elle tendit le cou pour voir les panneaux qu'il dépassait ils se dirigeaient vers saint-maur et pendant un moment elle crut que c'était leur destination mais le chauffeur continua après l'embranchement pour sortir de la ville c'est encore loin demanda-t-elle afin d'engager la conversation mais il marmonna quelque chose d'incompréhensible et augmenta le volume de la radio la pluie crépitait sur les vitres et le verre était froid contre sa joue. Elle aurait aimé prendre sa grosse veste dans le coffre. Elle était affamée et n'avait pas eu l'occasion d'acheter à manger. Après plus d'une demi-heure, ils arrivèrent en pleine campagne et longèrent la marne, où des péniches peintes de couleurs vives égayaient un peu la grisaille. Quelques personnes emmitouflées dans des imperméables marchaient sous les arbres. Certaines branches étaient déjà dégarnies. D'autres toujours garnis de feuilles d'un roux doré. Il fait très froid aujourd'hui, n'est-ce pas dit-elle, réessayant d'engager la conversation avec le chauffeur. Sa seule réponse fut un oui murmuré, mais au moins il alluma le chauffage et elle cessa de trembler. Bien au chaud, elle tomba dans un sommeil agité, tandis que filaient les kilomètres. Un freinage brusque et un coup de klaxon la réveillèrent. Le conducteur forçait le passage d'un camion à l'arrêt. Quittant la Nationale pour emprunter une route étroite bordée d'arbres. La pluie s'était dissipée et, dans la faible lumière du soir, la vue automnale était magnifique. Cassie regarda par la fenêtre, admirant le paysage vallonné et la tapisserie de champs en mosaïque entrecoupée de forêts immenses et sombres. Ils passèrent à côté d'un vignoble, les rangées nettes de vignes épousant le flanc de la colline. Le chauffeur ralentit pour traverser un village. Des maisons en pierre blanche, aux fenêtres cintrées et aux toits de tuiles aux pentes abruptes, bordaient la route. Au delà, elle aperçut des champs et un canal bordé de saules pleureurs, qu'ils franchirent sur un pont en pierre. La grande flèche de l'église attira son regard, et elle se demanda quel âge avait cette bâtisse. Ça doit être près du château, devina t-elle. Peut-être même dans son voisinage. Mais elle se ravisa lorsqu'ils quittèrent le village et s'enfoncèrent davantage dans les collines jusqu'à ce qu'elle soit totalement désorientée et perdit de vue ce haut clocher. Elle ne s'attendait pas à ce que le château soit si éloigné. Elle entendit le GPS annoncer signal perdu et le chauffeur grogna avec irritation, puis décrocha son téléphone et étudia la carte tout en conduisant. Ils tournèrent à droite, franchirent un haut portail et Cassie se redressa, fixant la longue allée de gravier. Devant, s'érigeant avec élégance, le soleil couchant éclairant ses murs de pierre, se trouvait le château. Les pneus crissèrent sur les pavés quand la voiture s'arrêta devant une grande et imposante entrée. Cassie se sentit toute nerveuse. Cette maison était bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. C'était comme un palais, surmonté de hautes cheminées et de tourelles ornées. Elle compta dix huit fenêtres maçonnées et ouvragées avec précision sur les deux niveaux de sa façade imposante. Elle donnait sur un jardin à la française, avec des haies soigneusement taillées et des allées pavées. Quel rapport aurait elle avec la famille à l'intérieur qui vivait dans une telle magnificence alors qu'elle sortait de rien? Elle remarqua que le chauffeur tapotait le volant avec impatience. Il n'allait clairement pas l'aider à sortir ses bagages. Elle quitta rapidement la voiture. Le vent impitoyable la refroidit aussitôt, et elle se précipita vers le coffre, malmena sa valise en la sortant, puis la tirant sur le gravier jusqu'à l'abri du porche, où elle enfila sa veste. Il n'y avait pas de sonnette sur la lourde porte en bois, seulement un gros heurtoir en fer qui était froid dans sa main. Le son qu'il produisit était étonnamment fort, et quelques instants plus tard Cassie entendit de légers bruits de pas. La porte s'ouvrit et elle se retrouva face à une bonne en uniforme noir, les cheveux tirés en arrière en un chignon serré. Derrière elle, Cassie aperçut un grand vestibule aux revêtements muraux opulents, avec un magnifique escalier en bois au fond. La bonne jeta un coup d'œil alentour alors qu'une porte claquait. Cassie devina aussitôt qu'il y avait une dispute. Elle sentait l'électricité dans l'air comme une tempête en approche. C'était évident dans la nervosité de la servante, dans le claquement de la porte, et dans le chaos de cris lointains qui s'estompèrent dans le silence. Ses entrailles se contractèrent, et elle éprouva un désir irrésistible de s'enfuir, de courir après le chauffeur en partance et le rappeler. Au lieu de cela, elle resta à sa place et força un sourire. Je suis Cassie, la nouvelle fille au père. La famille m'attend. Aujourd'hui? La servante avait l'air inquiète. Attendez un instant. Elle entra précipitamment dans la maison, et Cassie l'entendit appeler. Monsieur Dubois, venez vite, je vous prie. Une minute plus tard, un homme robuste aux cheveux bruns grisonnants accourut dans le vestibule, l'air furieux. Quand il vit Cassie à la porte, il s'arrêta dans son élan. Vous êtes déjà là s'étonna-t-il. Ma fiancée m'a dit que vous arriviez demain matin. Il se retourna vers la jeune femme blonde décolorée qui le suivait. Elle portait une robe de soirée et ses traits séduisants étaient crispés. Oui, Pierre, j'ai imprimé le mail quand j'étais en ville. L'agence a dit que le vol atterrissait à quatre heures du matin. Elle se tourna vers une table d'entrée en bois marqueté, écarta un presse papier en verre vénitien et brandit une feuille sur la défensive. Ici, tu vois? Pierre y jeta un coup d'œil et soupira. Il est écrit quatre heures de l'après midi, pas quatre heures du matin. Le chauffeur que tu as réservé connaissait manifestement la différence, alors elle est là. Il se tourna vers Cassie et lui tendit la main. Je suis Pierre Dubois. Voici ma fiancée, Margot. Il ne présenta pas la bonne. Au lieu de cela, Margot lui ordonna d'aller préparer la chambre en face de celle des enfants, et la servante s'éloigna d'un pas vif. Où sont les enfants? Ils sont déjà au lit? Ils devraient faire la connaissance de Cassie, suggéra Pierre. Margot secoua la tête. Ils sont en train de souper. Si tard. Ne t'ai-je pas dit que le souper doit avoir lieu tous les jours d'école? Même s'ils sont en vacances, ils devraient déjà être au lit pour respecter les horaires. Margot le dévisagea et haussa les épaules avec colère avant de se diriger vers la porte à droite, ses talons aiguilles cliquetant sur le carrelage. Antoinette appela-t-elle. Elle là, Marc. Elle fut récompensée par un brouhaha de pas et de cris un garçon brun se précipita dans le vestibule, tenant une poupée par les cheveux. Il était poursuivi de près par une fillette potelée et en larmes. Rends moi ma Barbie. Hurla t-elle. Le garçon stoppa en dérapant quand il vit les adultes, puis fonça vers l'escalier. Au passage, son épaule heurta le flanc rebondi d'un grand vase bleu et or. Cassie plaqua ses mains sur sa bouche, horrifiée, en voyant le vase vaciller sur son socle, puis s'écraser au sol où il se brisa en mille morceaux. Des éclats de verre colorés se répandirent sur les lattes de bois foncé du parquet. Le silence abasourdi fut rompu par le beuglement enragé de Pierre. Marc, donne sa poupée à Ella Traînant les pieds, affichant une moue boudeuse, Marc passa devant les débris. À contrecœur, il tendit la poupée à Pierre qui la remit à Ella. Ses sanglots s'apaisèrent au fur et à mesure qu'elle lissait les cheveux de la poupée. C'était un vase en verre durant, siffla Margot au jeune garçon. Antique, irremplaçable N'as-tu aucun respect pour les biens de ton père La seule réponse fut un silence maussade. Où est Antoinette demanda Pierre d'un ton agacé. Margot leva les yeux et, suivant son regard, Cassie aperçut une fille mince aux cheveux sombres en haut des escaliers. Elle semblait être l'aînée de quelques années. Élégamment vêtue d'une robe parfaitement repassée, elle attendait, la main sur la balustrade, d'avoir toute l'attention de la famille. Puis, le menton bien haut, elle descendit. Soucieuse de faire bonne impression, Cassie s'éclaircit la voix et tenta un salut amical. Bonjour les enfants. Je m'appelle Cassie. Je suis tellement ravie d'être ici et heureuse de m'occuper de vous. Ella sourit timidement en retour. Marc ne cessait de fixer furieusement les débris par terre, et Antoinette affronta son regard pendant un long et difficile moment. Puis, sans un mot, elle lui tourna le dos. Si tu veux bien m'excuser, papa, dit-elle à Pierre, j'ai des devoirs à finir avant le coucher. Bien sûr, opina Pierre, et Antoinette s'engouffra de nouveau dans l'escalier. Cassie se sentit rougir d'embarras devant ce snobisme délibéré. Elle se demanda si elle devait dire quelque chose, prendre la situation à la légère, ou tenter d'excuser le comportement grossier d'Antoinette, mais elle ne trouvait pas de mots appropriés. Margot marmonna furieusement. Je te l'avais dit, Pierre. Les humeurs de l'adolescence commencent déjà. Cassie se rendit compte qu'elle n'était pas la seule à avoir été ignorée par Antoinette. Au moins elle fait ses devoirs, bien que personne ne l'aide à les faire, rétorqua Pierre. Elle a, Marc, pourquoi ne vous présentez vous pas tous les deux correctement à Cassie? Il y eut un court silence. Manifestement, les présentations n'allaient pas se faire sans heurte. Mais peut-être pourrait elle apaiser l'attention en posant quelques questions. Eh bien, Marc, je connais ton nom, mais j'aimerais savoir quel âge tu as? demanda t-elle. J'ai huit ans, murmura t-il. En les comparant, Pierre et lui, elle distinguait une certaine ressemblance familiale. Des cheveux indisciplinés, un menton fort, des yeux bleus vifs. Même la façon dont il fronçait les sourcils était similaire. Les autres enfants étaient également bruns, mais Ella et Antoinette avaient des traits plus délicats. Et toi, Ella, tu as quel âge? J'ai presque six ans, annonça fièrement la petite. Mon anniversaire est le lendemain de Noël. C'est un bon jour pour un anniversaire. J'espère que ça t'apportera plein de cadeaux en plus. Ella afficha un sourire surpris, comme si c'était un avantage qu'elle n'avait pas encore considéré. Antoinette est la plus vieille, elle a douze ans, dit-elle. Pierre frappa dans ses mains. Bon, c'est l'heure d'aller au lit. Margot, peux-tu montrer la maison à Cassie après avoir couché les enfants Elle aura besoin de se repérer. Fais vite, nous devons partir à dix-neuf heures. Je dois encore finir de me préparer, répondit Margot d'un ton aigre. Tu peux coucher les enfants et appeler un majordome pour nettoyer ce cachis. « Je vais montrer la maison à Cassie. » Pierre y mit un soupir excédé, puis jeta un coup d'œil à Cassie et serra les lèvres. Elle supposa que sa présence lui avait fait ravaler sa réplique. « À l'étage et au lit » lança-t-il. Les deux enfants le suivirent à contre coeur dans l'escalier. Elle fut encouragée de voir Ella se retourner et lui faire un petit signe. « Venez avec moi, Cassie, » ordonna Margot. Cassie la suivit par la porte de gauche et entra dans un salon de réception aux meubles raffinés et aux murs ornés de tapisseries. La pièce était immense et froide. Il n'y avait pas de feu dans l'énorme cheminée. Ce salon est rarement utilisé et les enfants ne sont pas admis ici. La salle à manger principale est plus loin. Les mêmes règles s'appliquent. Cassie se demanda combien de fois la table à manger en acajou massif avait servi. Elle était immaculée et comportait seize chaises à haut dossier. Trois autres vases, semblables à celui que Marc avait brisé, décoraient le buffet ciré. Elle n'imaginait pas qu'un dîner joyeux puisse se dérouler dans cet espace aussi austère et silencieux. Quelle impression éprouvait on de grandir dans une telle maison où des zones entières étaient interdites à cause de l'ameublement qui pourrait être endommagé? Elle devina que cela pourrait donner à un enfant le sentiment qu'il était moins important que les meubles. On appelle cette pièce la chambre bleue. C'était un salon plus petit, tapissé de papier peint marine, avec de grandes portes vitrées. Cassie supposa qu'elle donnait sur un patio ou une cour, mais il faisait complètement noir, et tout ce qu'elle pouvait voir, c'étaient les lumières tamisées de la pièce reflétées dans le verre. Elle aurait aimé que la maison ait des lampes plus puissantes. Toutes les pièces étaient sombres, avec des ombres tapies dans les coins. Une sculpture attira son attention. Le support de la statue de marbre avait été cassé. Alors elle était posée sur une table, face en l'air. Ses traits étaient vides et figés, comme si la pierre recouvrait le visage d'un mort. Ses membres étaient trapus, grossièrement taillés. Frissonnante, Cassie détourna le regard de cette vue sinistre. C'est l'une de nos pièces les plus précieuses, l'informa Margot. Marc l'a fait tomber la semaine dernière. Nous la ferons réparer bientôt. Cassie pensa à l'énergie destructrice du jeune garçon et à la façon dont il avait cogné son épaule contre le vase auparavant. Cet acte avait il été totalement accidentel? Ou y avait il eu un désir subliminal de briser le vase, de se faire remarquer dans un monde où les possessions semblaient avoir la priorité? Margot la raccompagna par le chemin qu'elles avaient pris. Les chambres au bout de ce passage sont fermées à clef. La cuisine est par là, à droite, et au delà se trouvent les quartiers des domestiques. Il y a un petit salon à gauche et une salle où nous dînons en famille. Sur le chemin du retour, elles croisèrent un majordome en uniforme gris portant un balai, une pelle à poussière et une brosse. Il s'écarta devant elles, mais Margot ne lui accorda aucune attention. L'aile ouest était similaire à l'est. D'immenses pièces sombres avec un mobilier et des œuvres d'art de toute beauté, vides et silencieuses. Cassie frissonna, nostalgique d'une lumière intime et chaude ou du son familier d'une télévision, si une telle chose pouvait exister dans cette maison. Elle suivit Margot dans le magnifique escalier qui menait à l'étage. L'aile des invités. Trois chambres à coucher immaculées, meublées de lits à baldaquin, étaient séparées par deux grands salons. Les chambres étaient aussi nettes et formelles que des chambres d'hôtel, et les couvre-lits avaient dû être repassés à plat. Et l'aile familiale Cassie se dérida, contente d'atteindre enfin la partie de la maison où les gens vivaient. La crèche. À son grand désarroi, c'était une autre pièce vide, occupée seulement par un grand berceau à hauts barreaux. Et ici, les chambres des enfants. Notre suite est au bout du couloir, à l'angle. Trois portes fermées d'affilée. Margot baissa le ton, et Cassie devina qu'elle ne voulait pas entrer voir les enfants, ni même leur souhaiter bonne nuit. Voici la chambre d'Antoinette, puis celle de Marc, et la plus proche de la nôtre est celle d'Ella. Votre chambre est en face de celle d'Antoinette. La porte était ouverte et deux servantes s'affairaient à faire le lit. La pièce était immense et glaciale. Elle était meublée de deux chaises à dossier ailé, d'une table et d'une grande armoire en bois. De lourds rideaux rouges entouraient la fenêtre. Sa valise avait été posée au pied du lit. Vous entendrez les enfants s'ils pleurent ou s'ils appellent. Occupez-vous d'eux, s'il vous plaît. Demain matin, ils doivent être habillés et prêts pour huit heures. Ils iront dehors, alors choisissez des vêtements chauds. Je le ferai, mais. Cassie prit son courage à deux mains. Pourrais-je avoir à dîner, s'il vous plaît Je n'ai rien mangé depuis le dîner dans l'avion hier soir. Margot la dévisagea perplexe, puis secoua la tête. Les enfants ont mangé tôt parce que nous sommes de sortie. La cuisine est fermée maintenant. Le petit déjeuner sera servi à partir de sept heures demain. Vous pouvez attendre jusque là? Je je le suppose. Elle avait une faim de loup. Les bonbons interdits dans son sac destinés aux enfants furent tout à coup une tentation irrésistible. Et je dois envoyer un e-mail à l'agence pour leur dire que je suis là? Serait il possible d'avoir le mot de passe Wifi? Mon téléphone n'a pas de signal. Le regard de Margot devint vide. Nous n'avons pas de Wifi, et il n'y a pas de réseau ici, seulement un téléphone fixe dans le bureau de pierre. Pour envoyer un e-mail, vous devrez aller en ville. Sans attendre la réponse de Cassie, elle se retourna et se dirigea vers la chambre principale. Les servantes étaient parties, laissant le lit de Cassie dans un état de fraîcheur parfaite. Elle ferma la porte. Elle n'avait jamais imaginé qu'elle aurait le mal du pays, mais à ce moment là elle se languissait d'une voix amicale, du babillage de la télévision, du désordre d'un réfrigérateur bien rempli, de la vaisselle dans l'évier, des jouets traînant par terre, des vidéos YouTube diffusées sur les téléphones. Le chaos joyeux d'une famille normale, la vie à laquelle elle s'attendait. Au lieu de cela, elle sentait qu'elle était déjà mêlée à un conflit amer et compliqué. Elle ne pouvait espérer être instantanément amie avec ses enfants, pas avec la dynamique familiale qui s'était présentée jusque-là. Cet endroit était un champ de bataille, et bien qu'elle puisse trouver une alliée avec la jeune Ella, elle craignait de s'être déjà fait une ennemie avec Antoinette. Le plafonnier, qui vacillait, s'éteignit soudain. Cassie fouilla dans son sac à dos, prit son téléphone et déballa ses affaires du mieux qu'elle put avec le faisceau de la lampe torche, puis le brancha dans la seule prise visible de l'autre côté de la pièce et se faufila dans l'obscurité jusqu'à son lit. Gelée, inquiète et affamée, elle se glissa dans les draps froids et les tira jusqu'au menton, elle s'était attendue à se sentir plus optimiste et positive après avoir rencontré la famille. Mais elle doutait plutôt de sa capacité à faire face à eux et craignit ce que le lendemain allait lui apporter. Chapitre 4 La statue se tenait sur le seuil de la chambre de Cassie, encadrée par l'obscurité. Ses yeux sans vie s'ouvrirent et sa bouche s'écarta en se rapprochant d'elle. Les fissures autour de ses lèvres s'élargirent, puis tout son visage commença à se désintégrer. Des fragments de marbre cascadèrent en crépitant sur le sol. Non, chuchota Cassie. Mais elle ne pouvait pas bouger. Elle était coincée dans son lit, les membres gelés, même si son esprit paniqué l'implorait de s'enfuir. La statue se dirigea vers elle, bras tendus, des éclats de pierre s'échappant de ses membres. Elle émit un cri haut et ténu, et ce faisant, Cassie distingua ce qui était exposé sous la coquille de marbre. Le visage de sa sœur, froid, gris, mort. Non, non, non cria Cassie, et ses propres cris la réveillèrent. La pièce baignait dans une obscurité totale. Cassie était roulée en boule, toute tremblante. Elle se redressa, paniquée, cherchant un interrupteur absent. Sa pire peur celle qu'elle s'efforçait de réprimer le jour, mais qui se frayait un chemin dans ses cauchemars. La crainte que Jackie soit morte, parce que sinon, pourquoi sa sœur avait-elle brusquement cessé toute communication Pourquoi n'y avait-il pas eu de lettres, d'appels téléphoniques, de nouvelles d'elle depuis des années Tremblante de peur et de froid, Cassie réalisa que le crépitement des pierres dans son rêve était devenu celui de la pluie balayée par le vent et tambourinant contre la vitre et par dessus la pluie, elle entendit un autre bruit. Un des enfants criait. Vous entendrez les enfants s'ils pleurent ou s'ils appellent. Occupez vous d'eux, s'il vous plaît. Cassie se sentit perdue et désorientée. Elle aurait aimé allumer une lampe de chevet et prendre quelques minutes pour se calmer. Le rêve avait été si vif qu'elle se sentait encore engluée dedans. Mais les cris avaient dû commencer pendant qu'elle dormait. En fait, ils avaient peut-être provoqué son cauchemar. On avait besoin d'elle de toute urgence et elle devait se dépêcher. Elle repoussa la couette, découvrit que la fenêtre n'avait pas été correctement fermée. La pluie était entrée par l'interstice et la partie inférieure des couvertures était trempée. Elle se leva dans les ténèbres et traversa la chambre dans la direction qu'elle espérait que son téléphone se trouve. Une flaque d'eau avait transformé le carrelage en glace. Elle dérapa, perdit pied, atterrit avec fracas sur le dos. Sa tête heurta le cadre du lit et elle vit des étoiles. Bon sang! chuchota-t-elle, en se mettant à quatre pattes pour attendre que la douleur dans sa tête et les vertiges s'apaisent. Elle rampa sur le carrelage et chercha son téléphone à tâtons, espérant qu'il avait échappé à la flaque d'eau. À son grand soulagement, ce côté de la chambre était sec. Elle alluma la torche et se hissa douloureusement sur ses pieds. Sa tête palpitait et sa chemise était trempée. Elle l'ôta et enfila rapidement les premiers vêtements qu'elle put trouver, un survêtement gris. Pieds nus, elle se précipita hors de la chambre. Elle projeta sa lampe torche sur les murs, mais il n'y avait pas d'interrupteur à proximité. Elle suivit prudemment son faisceau dans la direction des cris, vers la suite des Dubois. La pièce la plus proche de la leur était la chambre d'Ella. Cassie frappa rapidement et entra. Heureusement, enfin de la lumière! Dans l'éclat du plafonnier, elle distingua le lit une place près de la fenêtre, où Ella avait repoussé sa couette. Criant et hurlant dans son sommeil, elle combattait les démons de son rêve. Ella, réveille-toi! Cassie ferma la porte et accourut s'asseoir sur le bord du lit. Elle saisit doucement les épaules de la fillette endormie, les sentit voûtées et tremblantes. Ses cheveux noirs étaient emmêlés, son haut de pyjama froissé. Elle avait repoussé sa couette bleue au fond du lit. Elle devait avoir froid. Réveille-toi, tout va bien. Tu fais juste un cauchemar. Ils viennent me chercher. Elle la sanglota, luttant pour échapper à son emprise. Ils arrivent, ils attendent à la porte. Cassie la serra fermement dans ses bras et la fit asseoir pour la calmer, tirant un oreiller derrière elle, tout en lissant son haut froissé. Elle a tremblé de peur. À la façon dont elle avait parlé d'eux, Cassie se demanda si ce n'était pas un cauchemar récurrent. Que se passait-il dans la vie d'Ella pour déclencher une telle terreur dans ses rêves? La fillette était complètement traumatisée et Cassie n'avait aucune idée de la meilleure façon de l'apaiser. Elle avait de vagues souvenirs de Jackie, sa sœur, agitant un balai devant un placard pour chasser un monstre imaginaire. Mais cette terreur avait ses racines dans la réalité. Les cauchemars avaient commencé après que Cassie s'était cachée dans le placard pendant l'une des crises éthyliques de son père. Elle se demanda si la peur d'Ella était également fondée sur quelque chose qui s'était produit. Elle devait essayer de le découvrir plus tard, mais pour l'instant, elle devait la convaincre que les démons étaient partis. Personne ne viendra te chercher. Tout va bien. Regarde un peu. Je suis là et la lumière est allumée. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent. Remplis de larmes, ils fixèrent Cassie pendant un moment, puis elle tourna la tête, se concentrant sur quelque chose derrière elle. Toujours effrayée par son propre cauchemar et par celui d'Allah, Cassie regarda rapidement autour d'elle, et son cœur battit la chamade quand la porte s'ouvrit. Margot se tenait sur le seuil, les mains sur les hanches. Elle portait une robe de chambre en soie turquoise, et ses cheveux blonds étaient noués en une tresse lâche. Ses traits parfaits n'étaient marqués que par une tache restante de mascara. Elle bouillonnait de rage, et Cassie sentit ses entrailles se nouer. Qu'est ce qui vous a pris si longtemps? Lança Margot d'un ton brusque. Les pleurs d'Ella nous ont réveillés. Ça a duré des heures. Nous avons eu une longue soirée. On ne vous paie pas pour que notre sommeil soit perturbé. Cassie la dévisagea, choquée par le fait que le bien-être d'Ella était apparemment la dernière chose que Margot avait à l'esprit. Je suis désolée, dit-elle. Ella s'accrochait à elle, l'empêchant de se lever et de faire face à sa patronne. « Je suis venue dès que je l'ai entendue, mais la lampe dans la chambre était grillée. Il faisait complètement noir, alors j'ai mis du temps à arriver. »« Oui, ça vous a pris trop de temps et c'est votre premier avertissement. Pierre travaille de longues heures et il se met en colère quand les enfants le réveillent. »« Mais... » Dans un élan de défi, la question surgit sur les lèvres de Cassie. « Vous n'auriez pas pu venir voir Ella si vous l'avez entendue pleurer ?»« C'est ma première nuit et je n'ai pas su m'orienter dans le noir. Je ferai mieux la prochaine fois, je le promets. Mais je veux dire, c'est votre enfant, et elle a fait un cauchemar horrible. Margot s'approcha de Cassie, les traits crispés. L'espace d'un instant, Cassie crut qu'elle allait s'excuser et qu'elles parviendraient ensemble à une trêve tendue. Mais cela ne se passa pas ainsi. Au lieu de cela, la main de Margot fouetta l'air et gifla Cassie violemment. Cassie réfréna un cri et des larmes perlèrent tandis que les pleurs d'Ella s'intensifiaient. Sa joue était brûlante sous le coup. La bosse sur sa tête palpitait plus fort, et son esprit chancelait de stupeur en réalisant que sa nouvelle patronne était violente. Avant votre embauche, c'était une cuisinière qui faisait votre travail. Et nous pouvons le refaire, nous avons beaucoup de serviteurs. C'est votre deuxième avertissement. Je ne tolère ni la paresse, ni un personnel qui répond. Votre troisième infraction signifiera un renvoi instantané. Maintenant, faites en sorte que l'enfant arrête de pleurer, qu'on puisse enfin dormir un peu. Elle quitta la pièce en claquant la porte derrière elle. Cassie prit vivement Ella dans ses bras, intensément soulagée de voir ses bruyants sanglots s'apaiser. C'est bon, chuchota-t-elle. Tout va bien, ne t'inquiète pas. La prochaine fois, je viendrai plus tôt. Je trouverai mieux mon chemin. Tu veux que je dorme ici pour le reste de la nuit Et on pourrait laisser ta lampe de chevet allumée pour plus de sécurité Oui, reste, s'il te plaît. Tu peux aider à les empêcher de revenir chuchota Ella. Et laisse la lumière allumée. Je ne crois pas qu'ils aiment ça. La chambre était meublée dans des tons bleus pastels, mais la lampe de chevet, avec son abat-jour rose, était un objet lumineux et réconfortant. Même en consolant Ella, Cassie avait envie de vomir, et elle remarqua que ses mains tremblaient violemment. Elle remua sous les couvertures, heureuse de leur chaleur, parce qu'elle était morte de froid. Comment pourrait elle continuer à travailler pour une employeuse qui l'avait maltraitée verbalement et physiquement devant les enfants? C'était impensable, inexcusable, et cela lui rappela trop ses propres souvenirs qu'elle avait réussi à oublier. Demain matin, à la première heure, elle devrait faire ses valises et partir. Mais elle n'avait pas encore reçu de paiement. Elle devrait attendre la fin du mois pour avoir le moindre argent. Elle n'avait pas les moyens de payer le trajet en taxi jusqu'à l'aéroport, sans parler des frais pour changer son billet d'avion. Il y avait aussi la question des enfants. Comment pourrait-elle les laisser entre les mains de cette femme violente et imprévisible Ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, surtout la jeune Ella. Elle ne pouvait pas rester assise là, la consoler et lui promettre que tout irait bien pour disparaître dès le lendemain. Avec un sentiment de malaise, Cassie se rendit compte qu'elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait pas partir en ce moment. Elle était obligée de rester, financièrement et moralement. Elle n'avait plus qu'à essayer de trouver le bon équilibre par rapport au tempérament de Margot, pour éviter de commettre sa troisième et dernière infraction. Chapitre 5 Cassie ouvrit les yeux et fixa le plafond inconnu avec confusion. Il lui fallut quelques instants pour s'orienter et réaliser où elle se trouvait dans le lit d'Ella, avec la lumière du matin qui s'infiltrait par une ouverture entre les rideaux. Ella dormait encore profondément, à moitié enfouie sous la couette. L'arrière de la tête de Cassie palpitait quand elle bougeait, et la douleur lui rappela tout ce qui s'était passé la veille au soir. Elle se redressa précipitamment, se souvenant des paroles de Margot, de la gifle cinglante et des avertissements qu'elle avait reçus. Oui, elle avait été fautive de ne pas s'être occupée d'Ella immédiatement, mais rien de ce qui s'était passé après n'avait été juste. Quand elle avait essayé de se défendre, elle avait davantage été punie. Elle avait peut-être besoin de discuter calmement de certaines règles de la maison avec la famille Dubois ce matin, pour s'assurer que cela ne se reproduirait plus. Pourquoi son réveil n'avait il pas encore sonné? Elle l'avait programmé pour six heures et demie, en espérant être pile à l'heure pour le petit déjeuner à sept heures. Cassie vérifia son téléphone et découvrit stupéfaite que la batterie était à plat. La recherche constante d'un signal avait dû l'épuiser plus vite que d'habitude. Elle se leva en silence, retourna dans sa chambre, le brancha sur le chargeur et attendit anxieusement qu'il s'allume. Elle marmonna un juron quand elle vit qu'il était presque sept heures et demie. Elle avait trop dormi et devait maintenant préparer tout le monde le plus vite possible. Elle se dépêcha de retourner dans la chambre d'Ella, ouvrit le rideau. Bonjour, dit elle. C'est une belle journée ensoleillée, et c'est l'heure du petit déjeuner. Mais Ella ne voulait pas se lever. Elle avait dû peiner à se rendormir après son cauchemar, et elle se réveillait de mauvaise humeur. Grincheuse et fatiguée, elle se cramponna à la couette en pleurnichant lorsque Cassie essaya de la retirer. Finalement, se souvenant des bonbons qu'elle avait rapportés, Cassie eut recours à la corruption pour la faire sortir du lit. Si tu es prête dans cinq minutes, tu auras un chocolat. Mais même là, d'autres luttes se profilèrent. Ella refusa de mettre la tenue que Cassie avait choisie pour elle. Je veux porter une robe aujourd'hui, insista-t-elle. Mais là, tu vas avoir froid si on sort dehors. Je m'en fiche. Je veux porter une robe. Cassie parvint finalement à un compromis en choisissant la robe la plus chaude qu'elle put trouver, une robe en velours côtelé, à manches longues, avec des chaussettes hautes et des bottes à doublure polaire. Elle s'assit sur le lit, balançant les jambes, la lèvre inférieure frémissante. Un enfant était enfin prêt, mais il en restait encore deux. Quand elle ouvrit la porte de la chambre de Marc, elle fut soulagée de voir qu'il était déjà réveillé et sorti du lit. En pyjama rouge, il jouait avec une armée de soldats dispersés sur le sol. La grande boîte à jouets en acier sous son lit était ouverte, entourée de voitures miniatures et d'un troupeau entier d'animaux de ferme. Cassie dut avancer prudemment pour éviter de marcher sur l'un d'eux. Bonjour Marc, on va prendre le petit déjeuner Comment veux-tu t'habiller Je ne veux pas m'habiller, je veux jouer, répliqua Marc. Tu pourras continuer à jouer après, mais pas maintenant. Nous sommes en retard et nous devons nous dépêcher. La réponse de Marc fut déclatée bruyamment en larmes. Ne pleure pas, s'il te plaît, supplia Cassie, inquiète des précieuses minutes qui filaient. Mais ses larmes s'intensifièrent comme s'il se nourrissait de sa panique. Il refusa catégoriquement de changer de pyjama, et même la promesse d'un chocolat ne put lui faire changer d'avis. Finalement, ne sachant plus que faire, Cassie lui fourra une paire de chaussons aux pieds. En lui prenant la main et en plaçant un soldat dans sa poche de pyjama, elle le persuada de la suivre à l'extérieur. Quand elle frappa à la porte d'Antoinette, il n'y eut aucune réponse. La chambre était vide et le lit proprement fait avec une chemise de nuit rose pliée sur l'oreiller. Heureusement, Antoinette avait trouvé toute seule son chemin jusqu'au petit déjeuner. Pierre et Margot étaient déjà assis dans la salle à manger familiale. Pierre portait un complet, et Margot était aussi élégamment habillée, avec son maquillage parfaitement fait et ses cheveux qui bouclaient sur ses épaules. Elle leva les yeux quand ils entrèrent, et Cassie sentit ses joues s'embraser. Rapidement, elle aida Ella à s'asseoir. Désolée, nous sommes un peu en retard, s'excusa-t-elle, troublée et déjà sur la défensive. Antoinette n'était pas dans sa chambre, j'ignore où elle est. Elle a fini son petit déjeuner et répète son morceau de piano. Pierre indiqua d'un signe de tête la salle de musique avant de se resservir du café. Écoutez, peut-être reconnaissez-vous la musique. Le Danube bleu. Faiblement, Cassie entendit une interprétation fidèle d'une mélodie qui lui paraissait en effet familière. Elle est très talentueuse! avança Margot, mais le ton acerbe de son commentaire ne correspondait pas à ses paroles. Cassie lui jeta un regard nerveux. Allait-elle dire quelque chose sur ce qui s'était passé la nuit dernière? Mais tandis que Margot la dévisageait en silence, Cassie se demanda soudain si elle aurait pu mal se souvenir de certaines choses. L'arrière de sa tête était sensible et enflée là où elle s'était cognée, mais quand elle toucha sa joue gauche, elle ne sentit aucun bleu dû à la cinglante claque. Ou bien était-ce la joue droite? C'était effrayant qu'elle ne s'en souvienne plus. Elle appuya sur sa joue droite, mais là non plus, elle n'éprouva aucune douleur. Cassie se persuada de cesser de s'inquiéter des détails. Elle pouvait ne pas avoir les idées claires après un rude choc sur la tête et une possible commotion cérébrale. Margot l'avait certainement menacée, mais l'imagination de Cassie avait pu lui faire croire à ce coup-là. Après tout, elle était épuisée, désorientée, et sortait tout droit des affres d'un cauchemar. Ses pensées furent interrompues par Marc qui réclamait son petit déjeuner. Elle versa du jus d'orange aux enfants et leur servit de la nourriture présentée sur des plateaux. Ella insista pour prendre jusqu'au dernier morceau de jambon et de fromage donc Cassie se contenta d'un croissant à la confiture et de quelques tranches de fruits. Margot buvait son café en silence, en regardant par la fenêtre. Pierre feuilletait un journal pendant qu'il finissait son toast. Les petits déjeuners étaient-ils toujours aussi silencieux se demanda cassie aucun des parents ne manifestait le moindre désir de communiquer avec elle avec les enfants ou entre eux était-ce parce qu'elle avait des ennuis peut-être qu'elle devrait engager la conversation et arranger les choses. Elle devait s'excuser formellement pour son retard à rejoindre elle là, mais elle ne pensait pas que sa punition avait été juste. Cassie choisit soigneusement ces mots dans sa tête. Je sais que j'ai été lente à m'occuper d'elle là hier soir. Je ne l'ai pas entendue pleurer, mais la prochaine fois je laisserai la porte de ma chambre ouverte. Cependant, je n'ai pas l'impression d'avoir été traitée équitablement. J'ai été menacée et maltraitée, et j'ai reçu deux avertissements à la suite en autant de minutes. Alors pourrions nous, s'il vous plaît, discuter de quelques règles de la maison maintenant? Non, ça ne marcherait pas. C'était trop direct. Elle ne voulait pas paraître hostile. Il fallait une approche plus douce qui ne ferait pas de Margot une ennemie. Quelle belle matinée, n'est ce pas? Oui, ce serait sans doute un bon début, qui apporterait un angle positif à la conversation, et à partir de là elle pourrait embrayer sur ce qu'elle voulait vraiment dire. Je sais que j'ai été lente à m'occuper d'elle là hier soir je ne l'ai pas entendue pleurer, mais la prochaine fois je laisserai la porte de ma chambre ouverte. Cependant j'aimerais que nous discutions maintenant de certaines règles de la maison, de la façon dont nous nous traitons les uns les autres et des situations qui peuvent susciter des avertissements, afin que je puisse m'assurer de faire le meilleur travail possible. Nerveuse, Cassie s'éclaircit la gorge et posa sa fourchette. Mais au moment où elle allait prendre la parole, Pierre plia son journal et se leva en même temps que Margot. Passez une bonne journée, les enfants, dit Pierre en quittant la pièce. Cassie les dévisagea perplexe. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire maintenant. On lui avait dit que les enfants devaient être prêts pour huit heures. Mais prêts pour quoi Elle ferait mieux de courir après Pierre pour s'en enquérir. Elle se dirigea vers la porte, mais lorsqu'elle l'atteignit, elle faillit se heurter à une femme au visage agréable, arborant un uniforme du personnel et portant un plateau garni. Ah oups, voilà, sauvée Elle redressa le plateau et remit les tranches de jambon en place. Vous êtes la nouvelle fille au père, n'est-ce pas Je suis Marnie, la gouvernante en chef. Enchantée, dit Cassie, réalisant que c'était le premier visage souriant qu'elle voyait de la journée. J'allais demander à Pierre ce que les enfants doivent faire aujourd'hui, dit-elle après s'être présentée. Trop tard, il doit être déjà parti. Il se rendait tout droit à la voiture. Il n'a pas laissé d'instructions Non, rien. Marny posa le plateau. Cassie donna plus de fromage à Marc et se servit avidement de pain grillé, de jambon et d'un œuf dur. Elle refusa de manger les aliments dans son assiette, les repoussant hargneusement avec sa fourchette. Vous pouvez peut-être demander aux enfants eux mêmes, suggéra Marny. Antoinette saura s'il y a quelque chose de prévu. Mais je vous conseille d'attendre qu'elle ait fini de jouer du piano. Elle n'aime pas que sa concentration soit perturbée. Était ce son imagination ou Marny leva t-elle les yeux au ciel sur ces mots? Encouragée, Cassie se demanda si elle pourrait devenir amie. Elle avait besoin d'une alliée dans cette maison. Mais ce n'était pas le moment de forger une amitié maintenant. Marny était clairement pressée de ramasser les assiettes vides et la vaisselle sale, tout en demandant à Cassie s'il y avait le moindre problème avec sa chambre. Cassie expliqua brièvement les problèmes, et après avoir promis de changer le couvre-lit et de remplacer l'ampoule avant le déjeuner, la gouvernante s'éclipsa. Le son du piano s'étant arrêté, Cassie se dirigea vers la salle de musique, près du vestibule. Antoinette rangeait sa partition. Elle se retourna et dévisagea Cassie avec méfiance quand elle entra. Elle était impeccablement vêtue d'une robe bleu roi ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et ses chaussures étaient parfaitement cirées. Tu es très jolie, Antoinette, cette robe est d'une si belle couleur, remarqua Cassie, espérant que les compliments amadouraient cette fille hostile. Y a t-il quelque chose que tu as prévu pour aujourd'hui? Des activités ou d'autres choses organisées? Antoinette réfléchit longuement avant de secouer la tête. Rien aujourd'hui, dit elle d'un ton décisif. Et Marc et Allah ont ils besoin d'aller quelque part? Non. Demain, Marc a un entraînement de foot. Antoinette referma le couvercle du piano. Eh bien, y a t-il quelque chose que tu aimerais faire maintenant? Peut-être que laisser Antoinette choisir les aiderait à créer des liens. On pourrait aller se promener dans les bois. On aime tous faire ça. Où sont les bois? un kilomètre ou deux plus loin sur la route. Elle fit un geste évasif. On pourrait partir tout de suite. Je vais t'indiquer le chemin. Je dois juste me changer. Cassie avait supposé que les bois se trouvaient dans l'enceinte de la propriété, et fut surprise par la réponse d'Antoinette. Mais une promenade dans les bois, c'était une activité de plein air saine et agréable. Cassie était sûre que Pierre approuverait. Vingt minutes plus tard, ils étaient prêts à partir. Cassie regarda dans chaque pièce pendant qu'elle escortait les enfants en bas, espérant voir Marny ou un autre membre du personnel pour pouvoir leur dire où ils allaient. Elle ne vit personne et n'avait aucune idée d'où chercher. Antoinette était impatiente de partir, sautillant d'un pied sur l'autre avec excitation, alors Cassie décida qu'entretenir sa bonne humeur était plus important, surtout s'il n'allait pas être parti trop longtemps. Ils descendirent l'allée en gravier et sortirent, Antoinette en tête. Derrière un immense chêne, Cassie aperçut un bloc de cinq écuries. Elle les avait remarquées lors de son arrivée la veille. Elle s'approcha pour les voir de plus près et découvrit qu'elles étaient vides et sombres, les portes béantes. Le champ au delà était inoccupé, les barrières de bois brisées, le portail dégondé, et les herbes folles qui poussaient sauvagement. Vous avez des chevaux ici? demanda t-elle à Antoinette. On en avait il y a des années, mais on n'en a plus depuis longtemps répondit-elle Aucun de nous ne fait plus d'équitation. Cassie resta plantée là à fixer les écuries désertes tandis qu'elle absorbait ce coup de théâtre. Maureen lui avait fourni des informations incorrectes et sérieusement périmées. Les chevaux avaient joué un rôle dans sa décision de venir ici. Ils avaient été un stimulant. Entendre parler d'eux avait rendu l'endroit meilleur, plus attirant, plus vivant, mais ils étaient partis depuis longtemps. Au cours de l'entretien, Maureen avait déclaré qu'elle aurait une réelle opportunité d'apprendre à monter à cheval. Pourquoi avait elle déformé les faits, et qu'aurait elle pu dire d'autre d'erroné? Allez. Antoinette tira sa manche avec impatience. Il faut qu'on y aille. En s'éloignant, Cassie se dit que Maureen n'avait aucune raison de falsifier les informations. Le reste de sa description de la maison et de la famille avait été assez exacte, et en tant qu'agent, elle ne pouvait que transmettre les données fournies. Si tel était le cas, cela voulait dire que c'était Pierre qui aurait menti, ce qui était encore plus troublant, réalisa t-elle. Après un virage, une fois le château hors de vue, Antoinette ralentit son allure, ce qui ne fut pas trop tôt pour Ella qui se plaignait que ses chaussures les faisaient mal. Arrête de pleurnicher. Conseilla Antoinette. Rappelle toi, papa dit toujours qu'il ne faut pas pleurnicher. Cassie priait là dans ses bras et la porta, sentant son poids augmenter à chaque pas. Elle portait déjà le sac à dos rempli des vestes de tout le monde avec ses derniers euros dans une poche latérale. Marc gambadait devant, brisant les branches des haies et les jetant sur la route comme des lances. Cassie dut lui rappeler constamment de s'éloigner de la chaussée. Il était si inattentif et inconscient qu'il pouvait facilement bondir sur le chemin d'une voiture arrivant en sens inverse. J'ai faim se plaignit elle là. Exaspérée, Cassie songea à l'assiette inentamée de son petit déjeuner. Il y a une boutique au coin de la rue, l'informa Antoinette. Ils vendent des boissons fraîches et des snacks. Elle semblait étrangement joyeuse ce matin, mais Cassie ignorait pourquoi. Elle était juste contente qu'Antoinette se montre plus chaleureuse envers elle. Elle espérait que la boutique vendrait des montres à bas prix, car sans téléphone, elle n'avait aucun moyen de savoir l'heure. Mais il s'avéra que c'était une pépinière, remplie de semis, de jeunes arbres et d'engrais. Le kiosque à la caisse ne vendait que des boissons gazeuses et des snacks. Le vieux commerçant, perché sur un tabouret de bar près d'un chauffage à gaz, expliqua qu'il n'avait rien d'autre. Les prix étaient anormalement élevés, et elle compta avec anxiété sa maigre réserve d'argent, achetant du chocolat et une canette de jus de fruits pour chacun. Pendant qu'elle payait, les trois enfants traversèrent la route en courant pour aller voir un âne. Cassie leur cria de revenir, mais ils l'ignorèrent. L'homme aux cheveux gris haussa les épaules par sympathie. Les enfants seront toujours des enfants. Cela me dit quelque chose. Vous habitez dans le coin Oui, ce sont les enfants du bois. Je suis leur nouvelle fille au père et c'est mon premier jour de travail, expliqua Cassie. Elle avait espéré une certaine reconnaissance entre voisins. Mais au lieu de cela, les yeux du marchand s'élargirent d'inquiétude. Cette famille là, vous travaillez pour eux? Oui. Les craintes de Cassie refirent surface. Pourquoi, vous les connaissez? On les connaît tous ici, acquiesça t-il. Et Diane, la femme de pierre, m'achetait parfois des plantes. Il remarqua son visage perplexe. La mère des enfants, précisa t-il. Elle est décédée l'année dernière. Cassie le dévisagea l'esprit en ébullition. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. La mère des enfants était morte et pas plus tard que l'année dernière. Pourquoi personne n'avait rien dit à ce sujet? Maureen n'en avait même pas parlé. Cassie avait cru que Margot était leur mère, mais maintenant elle se rendait compte de sa naïveté. Margot était beaucoup trop jeune pour être la mère d'un enfant de douze ans. C'était une famille qui venait de subir un deuil, qui avait été déchirée par une tragédie majeure. Maureen aurait dû lui en parler. Mais Maureen n'était pas au courant de la disparition des chevaux parce qu'on ne lui avait rien dit. La peur au ventre, Cassie se demanda si Maureen était même au courant de tout cela. Qu'était-il arrivé à Diane Comment sa perte avait-elle affecté Pierre, les enfants et toute la dynamique familiale Qu'avait-il pensé de l'arrivée de Margot au domicile si peu de temps après Pas étonnant qu'elle sentait des tensions dans presque toutes les interactions entre ces murs. C'est. c'est vraiment triste? bredouilla-t-elle, remarquant que le commerçant la regardait avec curiosité. J'ignorais qu'elle était morte si récemment. Je suppose que sa mort a dû être traumatisante pour tout le monde. Fronçant les sourcils, le marchand lui rendit sa monnaie et elle rangea son maigre reste de pièces. Vous connaissez les antécédents familiaux, j'en suis sûre. Je ne sais pas grand-chose, alors j'apprécierais vraiment que vous m'expliquiez ce qui s'est passé. Cassie se pencha anxieusement sur le comptoir. Il secoua la tête. Ce n'est pas à moi d'en dire plus, vous travaillez pour la famille. Qu'est-ce que ça changeait se demanda Cassie. Son ongle s'enfonça dans le vif de sa cuticule et elle constata avec consternation qu'elle avait repris son ancien tic de stress. Eh bien, oui, elle se sentait stressée. Ce que le vieil homme lui avait dit était assez inquiétant, mais ce qu'il refusait de dire l'était encore plus. Peut-être que si elle se montrait honnête avec lui, il serait plus ouvert. Je ne comprends pas du tout la situation là-bas, et j'ai peur de m'être mise dans l'embarras. Franchement, on ne m'a même pas dit que Diane était morte. Je ne sais pas comment c'est arrivé ni comment c'était avant. Si j'avais une meilleure vue d'ensemble, ça m'aiderait vraiment. Il hocha la tête, l'air plus sympathique, mais le téléphone sonna dans le bureau, et elle sut que l'occasion était perdue. Il sortit pour répondre, fermant la porte derrière lui. Déçu, Cassie se détourna du comptoir, hissant sur ses épaules son sac à dos qui semblait deux fois plus lourd qu'avant, à moins que ce ne soit l'information troublante que le commerçant lui avait donnée qui la pesait. Alors qu'elle sortait de la boutique, elle se demanda si elle aurait l'occasion de revenir seule et de parler au vieillard. Quels que soient les secrets qu'il connaissait sur la famille Dubois, elle mourait d'envie de les découvrir. Chapitre 6 Un cri terrifié d'Ella ramena Cassie au présent. Portant son regard de l'autre côté de la route, elle vit avec horreur que Marc avait franchi la clôture à poteaux de bois taillés et qu'il donnait des poignées d'herbe à un troupeau en pleine expansion qui comptait maintenant cinq ânes gris velus, incrustés de boue. Ils aplatissaient leurs oreilles et se mordaient les uns les autres pendant qu'ils l'entouraient. Ella hurla de nouveau quand l'un des ânes fonça sur Marc, le projetant à plat sur le dos. Sors de là cria Cassie, qui traversa la route au galop. Elle se pencha à travers la clôture et empoigna le dos de sa chemise, le traînant hors du pré avant qu'il ne soit piétiné. L'enfant avait-il un désir de mort Sa chemise était sale et trempée, et elle n'en avait pas apporté de rechange. Heureusement, le soleil brillait toujours, même si elle distinguait des nuages samoncelés à l'ouest. Quand elle donna son chocolat à Marc, il fourra toute la barre dans la bouche, les joues gonflées. Il rit, postillonnant des morceaux par terre, puis s'élança en avant avec Antoinette. Ella repoussa son chocolat et se mit à pleurer à chaudes larmes. Cassie prit de nouveau la fillette dans ses bras. Qu'est-ce qui ne va pas Tu n'as pas faim demanda-t-elle. Non, maman me manque sanglota elle. Cassie la serra fort contre elle, sentant la chaude joue d'Ella contre la sienne. Je suis désolée, Ella, je suis vraiment désolée. Je viens juste d'en entendre parler. Elle doit vous manquer terriblement. J'aimerais que papa me dise où elle est allée, se plaignit Ella. Mais Cassie était à court de mots. Le commerçant avait clairement dit que Diane Dubois était morte. Pourquoi Ella pensait elle le contraire? Qu'est ce que ton papa t'a dit? Demanda-t-elle prudemment. Il m'a dit qu'elle était partie et n'a pas voulu dire où. Il a juste dit qu'elle était partie. Pourquoi elle est partie Je veux qu'elle revienne. Ella appuya sa tête sur l'épaule de Cassie en sanglotant de tout son cœur. La tête de Cassie tournoyait. Ella avait quatre ans à l'époque et aurait sûrement compris ce que signifiait la mort. Ça aurait été l'occasion de faire son deuil et un service funèbre. Ou peut-être qu'il n'y en avait pas eu. Son esprit s'emballa à cette alternative que Pierre ait délibérément menti à Ella au sujet de la mort de sa femme. Ella, ne sois pas triste, dit elle en lui frottant doucement les épaules. Parfois les gens partent et ne reviennent pas. Elle pensa à Jackie, se demandant de nouveau si elle découvrirait un jour ce qui lui était vraiment arrivé. Ne pas savoir était terrible. La mort, bien que tragique, était au moins définitive. Cassie ne pouvait qu'imaginer la souffrance qu'elle avait dû endurer, croyant que sa propre mère l'avait abandonnée sans un mot. Pas étonnant qu'elle fasse des cauchemars. Il fallait qu'elle découvre la vraie histoire, au cas où il y aurait plus que ça. Demander directement à Pierre serait trop intimidant, et elle ne se sentirait pas à l'aise d'aborder le sujet, à moins qu'il n'en parle lui-même. Peut-être que les autres enfants lui donneraient leur version, si elle le demandait au bon moment. C'était peut-être la meilleure façon de commencer. Antoinette et Marc attendaient à une bifurcation. Finalement, Cassie aperçut les bois droit devant. Antoinette avait sous-estimé la distance. Il devait avoir parcouru au moins trois kilomètres, et la pépinière était le dernier bâtiment qu'elle avait vu. La route était devenue une voie étroite, son bitume craquelé et cassé, bordé de haies touffues et sauvages. Toi et là, vous pouvez emprunter ce chemin, conseilla Antoinette, en montrant un sentier envahi par la végétation. C'est un raccourci! Reconnaissante pour tout chemin plus court, elle se dirigea vers le sentier étroit, se frayant un chemin à travers une profusion de buissons feuillus. À mi-chemin, la peau de ses bras se mit à la brûler si douloureusement qu'elle cria, croyant avoir été piquée par un essaim de guêpes. En baissant les yeux, elle aperçut une éruption de rougeurs enflées sur toute sa peau, partout où les feuilles l'avaient effleurée. Et puis elle hurla Mon genou me pique sa peau gonflée en urticaire, marque rouge foncée sur sa chair douce et pâle. Cassie se baissa trop tard et une branche feuillue lui fouetta le visage. Aussitôt les piqûres se répandirent et elle cria affolée. Elle entendit au loin le rire strident et excité d'Antoinette. Enfouis ta tête dans mon épaule ordonna Cassie, les bras serrés autour de la fillette. Prenant une grande respiration, elle fonça le long du sentier, se faufilant aveuglément à travers les feuilles piquantes jusqu'à ce qu'elles surgissent dans une clairière. Antoinette hurlait de joie, pliée en deux sur un tronc d'arbre abattu, et Marc suivait son exemple, gagné par son hilarité. Ni l'un ni l'autre ne semblait se soucier des pleurs révoltés d'Ella. Tu savais qu'il y avait du sumac vénéneux ici, accusa Cassie en déposant Ella au sol. Des orties! La corrigea Antoinette avant d'éclater de rire à nouveau. Il n'y avait aucune bonté dans son rire. Il était tout à fait cruel. Cet enfant montrait son vrai visage et elle était sans pitié. La montée de rage de Cassie la surprit. Pendant un instant, son seul désir fut de gifler la figure suffisante et ricanante d'Antoinette aussi fort qu'elle le pouvait. La force de sa colère était effrayante. Elle s'avança, levant la main avant que la raison ne l'emporte et elle l'abaissa rapidement consternée par ce qu'elle avait failli faire. Elle se retourna, ouvrit son sac à dos, et fouilla pour trouver la seule bouteille d'eau. Elle en frotta un peu sur le genou d'Ella et le reste sur sa propre peau, en espérant que cela apaiserait la brûlure mais chaque fois qu'elle touchait les enflures, cela semblait les aggraver. Elle regarda autour d'elle pour voir s'il y avait un robinet ou une fontaine à proximité, où elle pouvait faire couler de l'eau froide sur l'éruption douloureuse. Mais il n'y avait rien, ces bois n'étaient pas la promenade familiale à laquelle elle s'attendait. Il n'y avait pas de bancs, pas de panneaux d'affichage, pas de poubelles, pas de robinets ni de fontaines, pas de sentiers bien entretenus. Il n'y avait qu'une forêt ancienne et sombre, avec des êtres, des sapins et des épicéas massifs qui surgissaient de sous-bois enchevêtrés. Nous devons rentrer à la maison maintenant, intima Cassie. Non, protesta Marc, j'ai envie d'explorer. Ce n'est pas un endroit sûr à explorer. Il n'y a même pas de bon chemin. Et il fait trop sombre. Tu devrais mettre ta veste maintenant ou tu vas attraper froid. Attrape-moi, attrape-moi! L'air espiègle, le garçon s'enfuit en se faufilant rapidement à travers les arbres. Merde! Cassie plongea après lui, serrant les dents quand des brindilles acérées déchiraient sa peau enflammée. Il était plus petit et plus rapide qu'elle, et son rire la narguait tandis qu'il s'enfonçait dans les sous-bois. Marc, reviens! appela-t-elle. Mais ses appels ne semblaient que l'aiguillonner. Elle le suivit avec obstination, espérant qu'il se fatiguerait ou déciderait d'abandonner le jeu. Elle le rattrapa finalement quand il s'arrêta pour reprendre son souffle, donnant des coups de pied aux pommes de pin. Elle saisit fermement son bras avant qu'il ne s'échappe de nouveau. Ce n'est pas un jeu. Tu vois, il y a un ravin droit devant. Le sol descendait en pente raide et elle entendait de l'eau qui coulait en bas. Allons-y maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Je ne veux pas rentrer à la maison grommela Marc en traînant les pieds derrière elle. Moi non plus, pensa Cassie, ressentant une soudaine sympathie pour lui. Mais quand il revint en la clairière, Antoinette était la seule présente. Elle était assise sur une veste pliée, tressant ses cheveux par-dessus son épaule. Où est ta sœur demanda Cassie. Antoinette leva les yeux, apparemment indifférente. Elle a vu un oiseau juste après ton départ, et elle voulait le voir de plus près. Je ne sais pas où elle est allée après ça. Cassie regarda Antoinette avec effroi. Pourquoi tu n'es pas allée avec elle? Tu ne m'as pas dit d'y aller? dit Antoinette avec un sourire froid. Cassie respira profondément, contrôlant une autre montée de rage. Antoinette avait raison. Elle n'aurait pas dû abandonner les enfants sans les prévenir de rester là où ils étaient. Où est elle allée? Montre moi où tu l'as vue pour la dernière fois. Antoinette pointa du doigt. Elle est partie par là. Je vais la chercher. Cassie prit un ton délibérément calme. Reste ici avec Marc. Ne sors pas, ne sors pas de cette clairière et ne laisse pas ton frère hors de ta vue, compris Antoinette hocha la tête avec ironie, peignant ses cheveux avec ses doigts. Cassie ne pouvait qu'espérer qu'elle ferait ce qu'on lui disait. Elle se dirigea vers l'endroit indiqué par Antoinette et mit ses mains autour de sa bouche. Elle a Cria-t-elle de toutes ses forces. Elle Elle attendit, espérant entendre une réponse ou des pas se rapprochant, mais il n'y eut pas de réponse. Tout ce qu'elle entendait, c'était le léger bruissement des feuilles dans le vent qui forcissait. Ella aurait-elle vraiment pu partir si loin pour ne pas l'entendre en si peu de temps Ou quelque chose lui était-il arrivé Prise de panique, elle s'enfonça en courant dans les bois. Chapitre 7 Cassie courut plus profond dans la forêt, se faufilant entre les arbres. Elle cria le nom d'Ella, priant pour entendre une réponse. Elle pouvait être n'importe où, il n'y avait pas de chemin précis qu'elle aurait pu suivre. Les bois étaient sombres et effrayants. Le vent soufflait en rafale et les arbres semblaient étouffer ses cris. Elle a été peut-être tombée dans un ravin ou avait trébuché et s'était cogné la tête. Elle avait pu être enlevée par un vagabond. Il pouvait lui arriver n'importe quoi. Cassie dérapa sur des pistes moussues et trébucha sur des racines. Son visage portait des centaines d'égratignures et sa gorge était à vif à force de crier. Elle s'arrêta enfin à bout de souffle. Sa sueur était froide et poisseuse dans la brise. Que faire maintenant La nuit commençait à tomber. Elle ne pouvait pas passer plus de temps à chercher ou elle les mettrait tous en danger. La pépinière était son escale la plus proche, si elle était encore ouverte. Elle pouvait s'y arrêter, raconter au commerçant ce qui s'était passé et lui demander d'appeler la police. Il lui fallut du temps et quelques détours pour revenir sur ses pas. Elle pria pour que les autres attendent sains et saufs, et elle espéra malgré tout qu'elle ait pu retrouver le chemin du retour. Quand elle rejoignit la clairière, Antoinette tressait des feuilles en guirlande et Marc s'était lové sur les vestes, endormi aucun signe d'elle Elle imagina la tempête de colère à leur retour. Pierre serait furieux, à juste titre, Margot serait tout simplement odieuse. Les lampes de poche brilleraient dans la nuit pendant que la communauté recherchait une fille perdue, blessée, ou pire, suite à sa propre négligence. C'était sa faute et son échec. L'horreur de la situation la submergea. Elle s'effondra contre un arbre et enfouit son visage dans ses mains, essayant désespérément de contrôler ses sanglots. Puis Antoinette lança d'une voix perçante. Ella. Tu peux sortir maintenant? Cassie leva les yeux et vit, incrédule, Ella se hisser par dessus un tronc couché, brossant des feuilles sur sa jupe. Quoi? Sa voix était rauque et tremblante. Où étais tu? Ella sourit joyeusement. Antoinette a dit qu'on jouait à cache-cache et que je ne devais pas sortir quand tu m'appelais, sinon je perdais. J'ai froid maintenant. Je peux avoir ma veste? Cassie était assommée par le choc. Elle n'arrivait pas à croire qu'on puisse inventer un tel scénario par pure méchanceté. Ce n'était pas seulement la cruauté, mais ses actions calculées qui refroidirent Cassie. Qu'est-ce qui poussait Antoinette à la tourmenter et comment pouvait-elle l'empêcher à l'avenir? Elle ne pouvait s'attendre à aucun soutien de la part des parents. Être gentil n'avait pas marché, et se mettre en colère ne ferait qu'entrer dans le jeu d'Antoinette. Celle ci avait toutes les cartes en main, et elle le savait. Maintenant, ils allaient rentrer extrêmement tard sans avoir dit à personne où ils étaient allés. Les enfants étaient affamés, assoiffés, épuisés et couverts de boue. Elle craignait qu'Antoinette ait fait plus qu'il n'en fallait pour qu'elle soit congédiée immédiatement. C'était une marche longue, froide et inconfortable pour rentrer au château. Ella insista pour être portée tout du long, et les bras de Cassie étaient près de lâcher quand ils arrivèrent. Marc traînait derrière, grognant, trop fatigué pour faire plus que de jeter une pierre de temps en temps sur les oiseaux dans les haies. Même Antoinette semblait ne prendre aucun plaisir à sa victoire et traînait les pieds maussades. Lorsque Cassie frappa à l'imposante porte d'entrée, elle s'ouvrit aussitôt à la volée. Margot l'affronta, rouge de rage. Pierre! cria-t-elle. Ils sont enfin rentrés! Cassie se mit à trembler en entendant le martèlement de pas coléreux. Où diable étiez-vous passé? beugla Pierre. C'est quoi cette irresponsabilité? Cassie déglutit. Antoinette voulait aller dans les bois, alors on est allé se promener. Antoinette, quoi? Toute la journée? Bon sang, pourquoi l'avez-vous laissé faire et pourquoi n'avez-vous pas obéi à vos instructions? Quelles instructions? Craignant sa colère, Cassie voulait fuir et se cacher comme elle l'avait fait quand elle avait dix ans et que son père s'était mis dans une de ses rages. En jetant un coup d'œil derrière elle, elle vit que les enfants ressentaient exactement la même chose. Leurs expressions terrifiées lui donnèrent le courage nécessaire pour continuer à affronter Pierre, même si ses jambes tremblaient. J'ai laissé un mot sur la porte de votre chambre. Non sans effort, il s'exprima d'un ton plus normal, il avait peut-être aussi remarqué la réaction des enfants. Je n'ai pas trouvé de mots. Cassie jeta un œil à Antoinette, mais ses yeux étaient baissés et ses épaules voûtées. Antoinette devait se produire à un récital de piano à Paris. Un bus est parti la chercher à huit heures et demie, mais elle était introuvable. Et Marc avait un entraînement de foot en ville à midi. Un nœud glacé serra l'estomac de Cassie quand elle réalisa à quel point les conséquences de ses actes avaient été graves. Elle avait déçu Pierre de la pire façon possible. Cette journée aurait dû être un test de ses capacités à organiser les horaires des enfants. Au lieu de cela, il s'était embarqué pour une escapade imprévue au milieu de nulle part et avait manqué des activités importantes. Si elle avait été à la place de Pierre, elle aurait également été furieuse. Je suis désolée, murmura-t-elle. Elle, elle n'osa pas dire franchement à Pierre comment les enfants l'avaient berné, même si elle était certaine qu'il s'en doutait. Si elle le faisait, il pourrait finir par souffrir de sa colère. Un gong retentit dans la salle à manger et Pierre consulta sa montre. Nous en reparlerons plus tard. Préparez-les pour le dîner maintenant. Vite, ou le repas va refroidir. C'était plus facile à dire qu'à faire. Il fallut plus d'une demi-heure et bien des larmes avant que Marc et Ella ne soient lavés et en pyjama. Heureusement, Antoinette se comporta bien et Cassie se demanda si elle ne se sentait pas dépassée par les conséquences de ses actes. Quant à elle, elle était abasourdie après cette journée catastrophique. À moitié trempée par les bains des enfants, elle n'eut pas le temps de prendre une douche. Elle enfila un haut sec et les marques sur ses bras ressurgirent. Ils descendirent l'escalier en groupe, l'air abattu. Pierre et Margot attendaient dans le petit salon à côté de la salle à manger. Margot sirotait un verre de vin pendant que Pierre se resservait un brandy au soda. Nous sommes enfin prêts à manger! observa Margot sèchement. Le dîner était en ragoût de poisson et Pierre insista pour que les deux aînés se servent eux-mêmes, bien qu'il permît à Cassie d'aider Ella. Ils doivent apprendre les bonnes manières dès leur plus jeune âge, dit-il, et il leur enseigna le bon protocole tout au long du dîner. Mets ta serviette sur tes genoux, Marc, et non froissée par terre. Et tes coudes doivent être rentrés. elle ne veut pas que tu la pousses du coude pendant que tu manges. Le ragoût était riche et délicieux, et Cassie était affamée. Mais la harangue de Pierre suffisait à décourager quiconque de manger. Elle se limita à de petites bouchées délicates, jetant un coup d'œil à Margot pour vérifier comment se comporter correctement à la française. Les enfants étaient épuisés, incapables de comprendre ce que disait leur père et Cassie se prit à souhaiter que Margot dise à Pierre que ce n'était pas le bon moment pour pinailler. Elle se demanda si les dîners étaient différents quand Diane était en vie, et à quel point la dynamique avait dû changer après l'arrivée de Margot. Sa propre mère avait posé un couvercle sur les conflits à sa façon silencieuse, mais ils avaient éclaté de façon incontrôlable lorsqu'elle était partie. Peut-être Diane avait elle joué un rôle similaire? Un peu de vin? À sa grande surprise, Pierre remplit son verre de vin blanc avant qu'elle ne puisse refuser. Cela faisait peut-être aussi partie du protocole. Le vin était parfumé et fruité, et après quelques gorgées, elle sentit l'alcool se diffuser dans ses veines, lui procurant un sentiment de bien-être et une décontraction dangereuse. Elle posa son verre hâtivement, sachant qu'elle ne pouvait se permettre aucune erreur. Elle Qu'est ce que tu fais? demanda Pierre exaspéré. Je me gratte le genou, expliqua Ella. Pourquoi utilises-tu une cuillère Mes ongles sont trop courts pour atteindre là où ça gratte. On a marché à travers les orties, dit fièrement Ella. Antoinette a montré en raccourci à Cassie. Je me suis fait piquer au genou. Cassie s'est fait piquer partout sur le visage et les bras. Elle pleurait. Margot posa violemment son verre de vin. Antoinette, tu as encore fait ça Cassie cligna des yeux, surprise d'apprendre qu'elle l'avait déjà fait. Je. commença Antoinette sur un ton de défi, mais Margot fut imparable. Tu es une vicieuse petite bête. Tout ce que tu veux, c'est causer des ennuis. Tu te crois maligne, mais tu n'es qu'une fille stupide, méchante et infantile. Antoinette se mordit la lèvre. Les paroles de Margot lui avaient fait perdre son sang-froid. Ce n'est pas de sa faute, dit Cassie à voix haute, se demandant trop tard si le vin n'avait pas été une mauvaise idée. Ça doit être très difficile pour elle de faire face à. Elle s'interrompit aussitôt, sur le point de mentionner la mort de leur mère mais Ella croyait en une version différente, et elle ne savait pas quelle était la véritable histoire. Ce n'était pas le moment de poser des questions. Faire face à tant de changements? reprit elle. En tout cas, Antoinette ne m'a pas dit de prendre ce chemin. Je l'ai choisi moi même. Ella et moi étions fatigués, et cela semblait être un bon raccourci. Elle n'osa pas regarder Antoinette pendant qu'elle parlait, au cas où Margot soupçonnerait une connivence, mais elle réussit à attirer l'attention d'Ella. Elle lui jeta un regard conspirateur, espérant qu'elle comprendrait pourquoi Cassie était du côté de sa sœur, et elle fut récompensée d'un petit signe de tête. Cassie craignait que sa défense ne la laisse sur un terrain encore plus instable, mais elle devait dire quelque chose. Après tout, elle savait ce que c'était que de grandir dans une famille fracturée où la guerre pouvait éclater à tout moment. Elle comprenait l'importance d'un modèle plus âgé qui pouvait offrir un abri contre les tempêtes. Comment se serait-elle débrouillée sans la force de Jackie dans les pires moments Antoinette n'avait personne pour la soutenir. Alors vous choisissez de prendre son parti siffla Margot. Faites-moi confiance, vous le regretterez, tout comme je l'ai fait. Vous ne la connaissez pas comme moi. Elle pointa un doigt manucuré vers Antoinette qui se mit à sangloter. Elle est comme ça, arrête rugit Pierre. Je ne tolérerai pas de dispute à table. Margot tais toi, tu en as assez dit. Margot se leva si brusquement que sa chaise se renversa avec fracas. Tu me dis de me taire? Alors je m'en vais. Mais ne croyez pas que je n'ai pas essayé de vous prévenir? Tu auras ce que tu mérites, Pierre. Elle gagna la porte puis se retourna, dévisageant Cassie avec une haine non déguisée. Vous aurez tous ce que vous méritez. Chapitre 8 Cassie retint son souffle pendant que les pas coléreux de Margot battaient en retraite dans le couloir. En parcourant la table du regard, elle se rendit compte qu'elle n'était pas la seule à avoir été réduite au silence par l'éclat violent de la femme blonde. Les yeux de Marc étaient larges comme des soucoupes et ses lèvres étaient serrées. Elle a sucé son pouce. Antoinette se renfrognait dans une fureur muette. En marmonnant un juron, Pierre repoussa sa chaise. Je m'en occupe, dit il en gagnant la porte à grands pas. Mettez les enfants au lit. Soulagée d'avoir un travail à faire, Cassie se leva et considéra les assiettes et les plats qui jonchaient la table. Devrait elle débarrasser ou demander l'aide des enfants? La tension planait dans l'air aussi épaisse que de la fumée. Elle souhaitait une activité familiale normale et quotidienne, comme la vaisselle, pour aider à la dissiper. Antoinette capta la direction de son regard. Laisse ça. Dit-elle. Quelqu'un débarrassera plus tard. S'efforçant à la bonne humeur, Cassie rétorqua Eh bien alors, c'est l'heure d'aller au lit. Je ne veux pas aller au lit protesta Marc en se balançant sur sa chaise. Il perdit l'équilibre et cria d'effroi en s'agrippant à la nappe. Cassie bondit à sa rescousse. Elle fut assez rapide pour empêcher la chaise de tomber, mais trop tard pour empêcher Marc de renverser deux verres et d'envoyer une assiette par terre. À l'étage ordonna-t-elle en essayant d'avoir l'air sévère, mais sa voix était aiguë et mal assurée à cause de l'épuisement. Je veux aller dehors, annonça Marc en courant vers les portes vitrées. Se rappelant qu'il l'avait distancée dans la forêt, Cassie lui fonça dessus. Il avait déjà déverrouillé la porte quand elle le rattrapa, mais elle réussit à l'empoigner et à l'empêcher de l'ouvrir. Elle aperçut leur reflet dans la vitre sombre. Le garçonnet aux cheveux rebelles et à l'expression impénitente, et elle-même ses doigts crochés dans ses épaules, ses yeux écarquillés et angoissés, son visage blanc comme un linge. En se voyant dans ce moment inattendu, elle se rendit compte à quel point elle avait échoué dans ses fonctions jusqu'à présent. Cela faisait une journée entière qu'elle était arrivée, et elle n'avait pas été responsable une seule minute. Elle se trompait elle même si elle pensait le contraire. Ses attentes de s'intégrer dans la famille et d'être aimée, ou du moins appréciée, par les enfants n'auraient pu être plus irréalistes. Il n'avait pas le moindre respect pour elle, et elle ne savait pas comment elle pouvait changer les choses. « C'est l'heure d'aller au lit », répéta-t-elle avec lassitude. Tout en gardant sa main gauche fermement sur l'épaule de Marc, elle enleva la clé de la serrure. Remarquant un crochet planté haut dans le mur, elle la suspendit dessus. Elle fit monter Marc à l'étage sans lâcher prise. Elle la trottinait à côté, et Antoinette traînait derrière, abattue. Elle claqua la porte de sa chambre sans même souhaiter bonne nuit. Tu veux que je te lise une histoire? demanda t-elle à Marc. Il secoua la tête. D'accord, au lit alors. Tu pourras te lever tôt demain et jouer avec tes soldats si tu te couches maintenant. Ce fut la seule motivation qui lui vint à l'esprit, mais cela semblait marcher, ou peut-être que la fatigue avait finalement eu raison du garçon. En tout cas, à son grand soulagement, il fit ce qu'elle demandait. Elle remonta la couette et remarqua que ses mains tremblaient d'épuisement. S'il faisait une autre tentative d'évasion, elle savait qu'elle allait fondre en larmes. Elle n'était pas convaincue qu'il resterait au lit, mais pour l'instant, du moins, son travail était terminé. Je veux une histoire. Ella lui tira le bras. Tu m'en lis une Bien sûr. Cassie se dirigea vers sa chambre et choisit un livre parmi la petite sélection sur l'étagère. Elle sauta dans son lit, rebondissant sur le matelas avec excitation, et Cassie se demanda combien de fois on lui avait fait la lecture dans le passé, car cela ne semblait pas faire partie de sa routine habituelle. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose de normal dans l'enfance d'Ella jusqu'à présent, supposa-t-elle. Elle lut l'histoire la plus courte qu'elle put trouver, mais Ella insista pour en avoir une deuxième. Les mots nageaient devant ses yeux quand elle arriva à la fin et referma le livre. En levant les yeux, Cassie fut soulagée de voir que la lecture avait apaisé Ella et qu'elle s'était enfin endormie. Elle éteignit la lampe et ferma la porte. En longeant le couloir, elle vérifia la chambre de Marc aussi silencieusement que possible. Heureusement, la pièce était toujours sombre et elle entendait une légère respiration. Quand elle ouvrit la porte d'Antoinette, elle trouva la lumière allumée. La jeune fille était assise dans son lit, griffonnant des notes dans un carnet à couverture rose. Tu frappes avant d'entrer, reprocha t-elle. C'est la règle. Désolée, je promets de le faire dorénavant, s'excusa Cassie. Elle craignait qu'Antoinette ne transforme la règle enfreinte en une dispute mais elle revint à son carnet, écrivant quelques mots de plus avant de le fermer. Tu finis tes devoirs? demanda Cassie, étonnée parce qu'Antoinette ne semblait pas être du genre à repousser les choses à la dernière minute. Sa chambre était impeccable les vêtements qu'elle avait enlevés tout à l'heure étaient pliés dans le panier à linge, et son cartable bien rangé était placé sous un bureau blanc parfaitement ordonné. Elle se demanda si Antoinette avait l'impression que sa vie manquait de contrôle et qu'elle essayait de l'exercer dans son environnement immédiat. Ou peut-être, puisqu'elle avait clairement fait savoir qu'elle n'appréciait pas la présence d'une fille au père, essayait elle de prouver qu'elle n'avait besoin de personne pour prendre soin d'elle. Mes devoirs sont faits, j'écrivais dans mon journal intime, l'informa Antoinette. Tu fais ça tous les soirs? Je le fais quand je suis en colère. Elle remit le capuchon sur son stylo. Je suis désolée pour ce qui s'est passé ce soir, sympathisa Cassie. Elle avait l'impression de marcher sur de la glace qui pourrait se briser à tout moment. Margot me déteste et je la déteste, dit Antoinette d'une voix quelque peu tremblante. Non, je ne crois pas que ce soit vrai, protesta Cassie, mais Antoinette secoua la tête. C'est vrai, je la déteste. J'aimerais qu'elle soit morte. Elle a déjà dit des choses comme ça avant. Ça me met tellement en colère que je pourrais la tuer. Cassie la dévisagea choquée. Ce ne furent pas seulement les paroles d'Antoinette, mais la façon calme dont elle les prononça qui lui firent froid dans le dos. Elle ne savait quoi répondre. Était-il normal qu'un enfant de douze ans ait ses pensées meurtrières? Antoinette devrait sûrement être aidée à gérer cette colère par quelqu'un de mieux qualifié, un conseiller, un psychologue, voire un curé. Eh bien, en l'absence de toute personne compétente, elle supposait qu'elle était la seule disponible. Cassie passa au crible ses propres souvenirs, essayant de se rappeler ce qu'elle avait dit et fait à cet âge, comment elle avait réagi et ce qu'elle avait ressenti quand sa propre situation avait dégénéré. Avait-elle déjà voulu tuer quelqu'un Elle se souvint soudain d'une des copines de son père, Hélène, une blonde aux longs ongles rouges et au rire aigu et strident. Elle s'était détestée dès le premier regard. Pendant les six mois qu'Hélène était sur les lieux, Cassie l'avait haïe avec ardeur. Elle ne se souvenait pas d'avoir souhaité sa mort, mais elle avait certainement souhaité qu'elle s'en aille. C'était probablement la même chose. Antoinette était plus franche, c'est tout. Ce que Margot a dit n'était pas juste du tout. A qui cassie parce que ça ne l'avait pas été. Mais les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas sous le coup de la colère. Bien sûr, les gens disaient parfois la vérité quand ils étaient en colère, mais elle n'allait pas s'engager dans cette voie. Oh elle le pensait, lui assura Antoinette. Elle tripotait son stylo, tordant violemment son capuchon en tous sens. Et papa prend toujours sa défense maintenant, et ne pense qu'à elle et jamais à nous. C'était différent quand maman était en vie. Cassie hocha la tête en signe de sympathie. C'était aussi son expérience. Je sais, dit-elle. Comment le sais-tu Antoinette la regarda avec curiosité. Ma mère est morte quand j'étais jeune. Mon père a aussi amené de nouvelles petites amies, euh, je veux dire une nouvelle fiancée, à la maison, ce qui entraîna beaucoup d'affrontements et d'hostilités. Ils ne m'aimaient pas, je ne les aimais pas. Heureusement que j'avais une soeur aînée. Activement, Cassie rectifia. J'ai une sœur aînée, Jackie. Elle a tenu tête à mon père et m'a aidé à me protéger quand il y avait des disputes. Antoinette acquiesça d'un signe de tête. Tu as pris ma défense ce soir. Personne n'a jamais fait ça avant. Merci de l'avoir fait. Elle contempla Cassie de ses grands yeux bleus et Cassie sentit une boule dans sa gorge devant cette gratitude inattendue. C'est pour ça que je suis là, dit-elle. « Je suis désolée de t'avoir envoyé marcher dans les orties. » Elle jeta un œil aux mains de Cassie, toujours enflées et enflammées. « Ce n'est vraiment pas un problème. Je comprends que c'était juste une blague. » Des larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'une vague de sympathie débordait en elle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'Antoinette baisse sa garde. Elle comprenait tout à fait à quel point celle-ci devait se sentir seule et vulnérable. C'était terrible de penser qu'Antoinette avait déjà subi des violences verbales de la part de Margot, sans que personne ne soit là pour la protéger, elle et son père s'étant délibérément ligués contre elle. Eh bien, elle avait quelqu'un maintenant. Cassie était de son côté, et la soutiendrait quoi qu'il en coûte. La journée n'avait pas été un désastre complet si elle avait réussi à se rapprocher de cet enfant complexe et troublé. Essaie de dormir maintenant. Je suis sûre que les choses iront mieux demain matin. Je l'espère bien. Bonne nuit, Cassie. Cassie ferma la porte, renifla un bon coup et essuya son nez sur sa manche. L'épuisement et l'émotion prenaient le dessus. Elle se précipita dans le couloir, attrapa son pyjama et se dirigea vers la douche. Sous le jet d'eau fumant, elle laissa finalement couler ses larmes. Bien que l'eau chaude ait apaisé ses émotions, Cassie se rendit vite compte qu'elle avait provoqué une nouvelle éruption cutanée. Les piqûres d'ortie commençaient à la démanger d'une manière insupportable. Elle se frotta fortement avec sa serviette pour tenter d'apaiser la démangeaison, mais elle ne réussit qu'à l'étendre. Après s'être mise au lit, elle se sentit si mal à l'aise qu'elle n'arrivait pas à dormir. Son visage et ses bras l'élançaient et la brûlaient. Se gratter n'offrait qu'un soulagement temporaire et ne faisait qu'aggraver la douleur. Après des heures à tenter en vain de s'endormir, Cassie avoua sa défaite elle avait besoin de quelque chose pour apaiser sa peau. Le placard de la salle de douche ne contenait que l'essentiel, mais elle avait vu une grande armoire dans la salle de bain au delà de la chambre d'Ella. Peut-être y aurait il là quelque chose qui pourrait convenir? Elle se rendit en silence dans la salle de bain, ouvrit l'armoire en bois, et fut soulagée de voir qu'elle était remplie de tubes et de flacons. Il devait bien y avoir quelque chose contre les allergies, elle lut les étiquettes, déchiffrant avec peine le français compliqué, nerveuse à l'idée que l'application d'un mauvais remède puisse rendre les choses encore pires. L'otion à la calamine. Elle reconnut la couleur et l'odeur même si l'étiquette n'était pas familière. Cela apaiserait sa peau. Cassie versa un peu de l'otion dans le creux de sa main et l'étala sur les brûlures. Elle ressentit aussitôt un frais soulagement. Elle remit le flacon en place et referma l'armoire. En se retournant pour partir, elle entendit un bruit et se figea. C'était un cri brutal, étouffé. Ce devait être Marc. Il avait dû se lever du lit et causer des problèmes à Ella. Elle se précipita dans le couloir, mais se rendit compte après quelques pas que ce côté de la maison était calme et que les enfants dormaient. Cela se reproduisit. Un fracas, un choc sourd et un autre cri. Cassie se figea. Quelqu'un était-il entré par effraction dans la maison? Son esprit se mit à galoper en pensant à tous les trésors qu'elle contenait. Aux États-Unis, elle se serait enfermée dans sa chambre et aurait appelé la police. Mais il n'y avait pas de réseau ici, donc le mieux à faire était d'alerter Pierre. On aurait dit que ça venait de cette direction là, de toute façon. Elle se sentirait plus courageuse si elle avait une arme. Elle parcourut sa chambre du regard. Peut-être qu'elle devrait prendre le tisonnier en acier, près de la cheminée. Ce n'était pas grand chose, mais c'était mieux que rien. Saisissant fermement le tisonnier, Cassie longea le couloir sur la pointe des pieds. Elle tourna à l'angle et se retrouva face à une porte close. Cela devait être la suite parentale, et le bruit venait de l'intérieur. Cassie appuya le tisonnier contre le mur afin de l'attraper rapidement si nécessaire. Puis elle se pencha et jeta un coup d'œil par le trou de la serrure. Les lumières étaient allumées dans la chambre. Son champ de vision était limité, mais elle pouvait distinguer une personne non, deux. Il y avait Pierre, ses cheveux bruns qui brillaient dans la lumière. Mais que faisait il avec ses mains? Elles étreignaient quelque chose qu'il serrait et secouait violemment. Un autre cri plaintif et étouffé lui parvint, et Cassie retint brusquement son souffle lorsqu'elle se rendit compte qu'il serrait le cou d'une femme. Son cœur battant la chamade, elle décrypta alors la scène qui se déroulait à travers le petit trou dans la porte. Pierre était en train d'assassiner Margot. Chapitre 9. Cassie s'éloigna de la lourde porte en bois, l'adrénaline s'épanchant en elle alors qu'elle repensait à cette scène mortelle. Ses mains épaisses serrées autour d'un coup pâle, ses cris étranglés de panique. Il y avait eu autre chose également, une éclaboussure de couleurs vives qu'elle ne comprenait pas. Elle avait besoin d'appeler à l'aide, et vite. Mais qui pourrait elle appeler? La gouvernante était la seule personne qu'elle connaissait, et elle ne savait pas où la trouver. De toute façon, si elle perdait son temps à la chercher, Margot mourrait. C'était aussi simple que ça. En fait, Cassie elle même devait intervenir. Si elle s'engouffrait dans la chambre en criant à tue tête, cela provoquerait une distraction qui, espérait elle, permettrait à Margot de se libérer. Une peur bleue l'envahit à cette pensée, mais elle se dit qu'il fallait le faire. Même si ses jambes se transformaient en eau et que sa voix n'était qu'un petit cri pathétique, elle devait essayer d'être courageuse. Alors qu'elle tendait la main vers la poignée de la porte, elle entendit un autre bruit qui l'arrêta dans son élan. C'était un gémissement grave et profond de plaisir. Hésitante, Cassie se pencha et regarda de nouveau à travers le trou de serrure. Bougeant la tête d'un côté à l'autre pour tirer le meilleur parti de sa vue étroite, Cassie réalisa que l'objet qu'elle avait vu était un foulard aux couleurs vives. Les poignets de Margot étaient étroitement liés et le foulard était noué à un rail en laiton qui devait être la tête de lit. Cassie sursauta lorsqu'elle réalisa ce qui se passait. Ce n'était pas un meurtre mais un acte sexuel, sombre, violent et prolongé. Elle pouvait voir Margot lutter pour se libérer. Ce n'était pas seulement une expérience perverse, c'était carrément dangereux, et elle n'était pas du tout sûre que ce soit consensuel. Margot n'avait pas l'air d'être une partenaire consentante. Peut-être Pierre la punissait il pour son accès de colère, ou s'en servait il comme excuse pour faire ce qu'il faisait maintenant? Cassie se dit fermement que même si l'acte était horrible, il se déroulait en privé et ne la concernait absolument pas. Si Pierre ou Margot découvraient qu'elle matait, elle aurait de sérieux ennuis et si l'un des enfants la voyait regarder par le trou de la serrure, elle ne voulait pas imaginer quelles en seraient les conséquences. Cassie recula, mais sous le choc de ce qu'elle avait vu, elle oublia complètement le tisonnier qu'elle avait placé contre le mur. Elle le heurta du pied, et il tinta fort sur le sol de marbre. Les gémissements s'arrêtèrent soudain. Après un bref silence, Pierre appela d'une voix aiguë. Qu'est ce que c'est qui est là? Il avait entendu. Le grincement des ressorts de lit et le martèlement sourd des pieds sur le parquet lui dirent qu'il venait voir. Cassie ramassa le tisonnier et s'enfuit dans le couloir, courant aussi vite et sans bruit que possible. Elle pria pour que Pierre prenne le temps d'enfiler une robe de chambre ou des pantoufles et qu'elle soit hors de vue avant qu'il n'ouvre la porte. Parce que s'il la voyait, s'il se doutait seulement qu'elle était passée par là, elle aurait beaucoup de mal à s'en sortir. Elle tourna à l'angle et dérapa sur les dalles de marbre, s'agrippant frénétiquement au mur pour s'empêcher de tomber. Son doigt se tordit douloureusement et elle réfréna un cri. Derrière elle, elle entendit le déclic du loquet quand la porte de la chambre s'ouvrit. Et puis elle entendit le claquement des pieds dans le couloir. Pierre la poursuivait à toute allure. Des scénarios cauchemardesques traversèrent l'esprit de Cassie alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre. Elle ferma la porte aussi silencieusement qu'elle le put et remit le tisonnier dans la cheminée, en essayant d'empêcher ses mains de trembler afin qu'il ne ferraille pas contre l'âtre. Un instant plus tard, elle sauta dans son lit et remonta les couvertures jusqu'au menton. Le cœur battant dans sa gorge, elle attendit le passage de Pierre. Parce que bien sûr, il passerait par là, n'est-ce pas? Il n'aurait aucune raison de frapper s'il voyait que sa porte était fermée. Les pas s'arrêtèrent devant sa porte et Pierre ne frappa pas. Au lieu de cela, à la stupéfaction de Cassie, il l'ouvrit tout simplement. Il alluma la lumière et resta debout sur le pas de la porte. Son visage était rouge, il était pieds nus et portait une robe de chambre bordeaux. La première pensée immédiate et principale de Cassie fut que c'était une invasion complète de la vie privée, et n'était pas convenable, en aucune façon, pour un employeur d'entrer dans la chambre d'une employée, seule, et après les heures de travail, sans frapper à la porte. Sa présence dans son espace privé la rendait sur la défensive et vulnérable, déclenchant de vieux souvenirs qui s'étaient transformés en cauchemars. Des gens dans sa chambre, cachés sous le lit. Et petite-fille, Pierre la regarda fixement, puis regarda autour de lui, le regard rivé sur sa serviette de bain accrochée au crochet près de la porte et le tas de vêtements qu'elle avait laissé plier sur le fauteuil près de la cheminée. Pierre la regarda fixement puis regarda autour de lui, le regard rivé sur sa serviette de bain accrochée au crochet près de la porte, et le tas de vêtements qu'elle avait laissé plier sur le fauteuil près de la cheminée. Cassie s'assit, redressant son haut de pyjama et croisant par réflexe ses bras sur sa poitrine. Elle voulait lui crier de sortir qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans sa chambre sans permission. Mais ce n'était pas le moment de discuter des limites, pas après avoir maté ses activités privées à travers la porte de sa chambre à coucher. Avez-vous entendu quelque chose, Cassie Il y a eu un bruit tout à l'heure. Le fort tintement qu'il avait perçu était la preuve indéniable que quelqu'un était debout. C'était son travail de réagir au bruit et aux perturbations nocturnes, donc elle ne pouvait pas prétendre qu'elle ne l'avait pas entendu. Elle devait offrir à Pierre une explication cohérente de ce qui s'était passé. Elle vit qu'il la regardait curieusement et se souvint tout à coup des traces fraîches de lotion sur son visage et ses bras. Grâce à cela, la réponse lui vint à l'esprit. Elle respira profondément, essayant de parler aussi calmement que possible et de ne pas paraître essoufflée. C'était moi. J'étais dans la salle de bain au bout du couloir, je prenais de la lotion pour ma peau. Ça me démangeait tellement que je n'arrivais pas à dormir. J'ai renversé une bouteille en verre pendant que je rangeais la lotion. Elle ne s'est pas cassée, mais elle a fait un bruit terrible en tombant. Je suis désolée de vous avoir réveillée. Pierre fronça les sourcils puis hocha la tête comme si cela lui paraissait logique. Votre peau, ça va maintenant Je pense que tout ira bien. La lotion a stoppé les démangeaisons. Voulez-vous que j'aille voir les enfants au cas où je les aurais réveillés Pierre s'arrêta et écouta. Ce n'est pas nécessaire. Tout a l'air silencieux. Mieux vaut les laisser tranquilles s'ils dorment. Elle pensait qu'il allait partir, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il s'approcha de la pile de vêtements sur le bureau. Se pencha et récupéra un objet plié sur le sol. Les yeux de Cassie s'élargirent d'inquiétude quand elle vit que c'était son soutien-gorge noir. Elle l'avait laissé sur le dessus de la pile, mais elle avait dû le faire tomber, probablement lorsqu'elle s'était précipitée pour remettre le tisonnier en place. Pierre le secoua avant de le placer soigneusement sur la pile. Vous ne devez jamais plier de soutien-gorge, la réprimanda-t-il. Ils devraient être rangés ouverts, empilés ensemble, de préférence dans un tiroir. C'est mieux pour eux. Il regarda ses vêtements et hocha la tête en signe de satisfaction, tandis que Cassie se tassait contre le mur, tirant le couvre-lit plus haut sur son corps. Elle était sûre que sa culotte était sous le soutien gorge, ce qui veut dire qu'il avait dû la voir aussi. Elle était trop choquée par son comportement pour réfléchir à une réponse, mais Pierre ne semblait pas en attendre. Bonne nuit. Il regagna la porte, éteignit la lumière et partit en fermant derrière lui. Cassie exhala un long et profond soupir. Elle décroisa les bras et remarqua que ses mains tremblaient encore. Il n'avait pas le droit de venir ici sans frapper. Aussi innocents qu'aient pu être ses motifs, c'était une violation totale. Ouvrir sa porte, allumer la lumière, entrer dans sa chambre pour examiner ses sous-vêtements et lui donner des conseils sur la façon de les ranger. Elle aurait souhaité avoir eu le temps de reprendre ses esprits pour lui dire à quel point son comportement était déplacé. Elle commençait à se rendre compte que Pierre ne se souciait pas des limites. Ses actions lui avaient révélé une facette plus sombre de lui-même, une facette avide et possessive, quelles qu'en soient les conséquences. Il n'y avait pas de clé à la porte de sa chambre, et bien que Marnie puisse peut-être trouver une clé si elle le lui demandait, elle ne pouvait pas s'enfermer sans susciter la suspicion et la critique de ses employeurs. Il lui faudrait trouver un autre moyen d'installer une alarme. Peut-être pourrait-elle faire passer une ficelle de la poignée de la porte à la chaise, de sorte qu'elle se renverse si la porte s'ouvrait Elle pourrait dire qu'elle l'avait fait pour se réveiller immédiatement si les enfants entraient. Elle devait mettre un plan de secours en place de toute urgence. Car que ferait-elle si Pierre décidait de venir dans sa chambre pendant son sommeil Chapitre 10 Cassie se réveilla avant que son alarme ne sonne. Elle transpirait, lovée et blottie sous la couette. Elle devina qu'elle avait émergé d'un cauchemar. En levant les yeux, elle s'aperçut que la porte de la chambre était fermée. Elle se rappelait qu'elle était grande ouverte, mais cela devait faire partie de son rêve. Sans nul doute, Pierre l'avait fermée en partant. Penser à Pierre lui rappela le scénario violent de la veille, la façon dont Margot avait essayé de crier, et ces bruits sourds étaient quoi? avait elle lutté pour se libérer de ses attaches? Préoccupée par l'agression de Margot et le comportement obstiné des enfants, elle n'avait guère pensé à Pierre. D'après son comportement, elle avait deviné qu'il était lunatique, dominateur, un peu perfectionniste. Elle n'avait jamais imaginé qu'il ait un côté plus sombre qui le poussait à assouvir des désirs sexuels dangereux. Cassie se demanda soudain si l'un des enfants l'avait espionné de la même façon qu'elle. Cette idée était trop troublante pour qu'elle puisse la creuser, alors elle la rejeta. Il était cinq heures et demie du matin, trop tôt pour réveiller les enfants, mais au moins elle pouvait prendre un peu de temps pour se rendre présentable. Cassie se doucha, se lava les cheveux et utilisa un peu du sérum qu'elle avait apporté pour sécher ses cheveux lisses et brillants. Elle se maquilla légèrement, une touche de fond de teint pour éclaircir sa peau pâle et fatiguée, et du rouge à lèvres rose. Elle mit un jean, des bottes et un haut turquoise. Finalement, elle obtint l'apparence soignée et professionnelle qu'elle avait espéré avoir dès son premier jour. Se rappelant que les limites étaient importantes pour Antoinette, et ressentant une empathie renouvelée pour elle à cet égard, elle frappa à sa porte et attendit la réponse. Elle dut frapper trois fois avant de recevoir un Oui, maussade en guise de réponse. Cassie avait espéré qu'Antoinette serait plus amicale envers elle après leur conversation de la veille au soir, mais celle-ci semblait avoir rebâti ses barrières encore plus haut. Boudeuse et peu coopérative, elle prêta à peine attention au chaleureux Bonjour de Cassie. Laisse-moi m'habiller, lança-t-elle. Je viendrai au petit déjeuner toute seule. Cassie supposa que Marc s'était remis à jouer avec ses jouets, entouré du même désordre qu'elle avait vu la veille mais quand elle entra dans sa chambre, elle fut inquiète de le voir encore au lit tourné vers le mur. Marc, tu es malade? demanda t-elle. Elle voulut toucher son front pour voir s'il avait de la fièvre, mais il lui repoussa la main avec empressement. J'aime pas cette journée, ronchonna t-il. Mais c'est une belle journée, plaida Cassie en tirant les rideaux. Le soleil n'était pas encore levé, mais le ciel était sans nuages et l'horizon déjà bien doré. « Je déteste cette journée, je ne vais pas me lever maintenant. Je veux du jus d'orange. Apporte-moi du jus d'orange. » Elle ignorait s'il était vraiment malade ou juste de mauvaise humeur, mais de toute façon, lui apporter du jus d'orange paraissait un compromis raisonnable. Cassie descendit, soulagée de voir que Marnie était déjà en train de dresser la table du petit-déjeuner, prenant une pile d'assiettes et des sets de table sur le buffet en bois. « Bonjour, tu es matinale aujourd'hui » salua-t-elle Cassie. Marc veut du jus d'orange. Est-ce qu'on peut lui apporter un verre? Il s'est réveillé de mauvaise humeur. Antoinette aussi. Je n'ai même pas encore osé aller dans la chambre d'Ella. Marny réfléchit un instant. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est le premier novembre. Cassie la regarda sans comprendre. C'est la Toussaint ici en France, mais c'est aussi le jour du décès de Diane. C'est à cette époque que c'est arrivé, l'année dernière. C'est probablement pour ça qu'ils sont tristes, ça leur rappelle la perte de leur mère. Comme c'est un jour férié, la date est facile à retenir. Elle haussa les épaules avec sympathie. Attends un instant, je vais chercher le jus. Cassie attendit, mal à l'aise, souhaitant en savoir plus sur ce qui s'était passé. Marnie trouverait-elle Cassie grossière ou trop directe si elle le demandait Elle craignait que les convenances françaises soient différentes. Peut-être n'était-il pas acceptable de poser une question aussi directe. Et elle ne voulait certainement pas que Marnie s'éloigne d'elle. La gouvernante revint dans la salle à manger avec un pichet débordant de jus d'orange. Elle le posa sur un set de table et tendit un verre à Cassie. J'espère que Marc se sentira mieux. C'est un enfant si lunatique, conclut elle, et Cassie opina. Elle remplit le verre aux trois quarts. Il était en cristal lourd et orné, aux facettes pointues sous ses doigts. Elle aurait préféré apporter à Marc un simple gobelet en plastique, mais cela ne semblait pas être une option dans cette maison. Je ferai tout aujourd'hui pour les réconforter, lui et Antoinette, dit elle. Sais tu s'ils ont des activités prévues? Je me suis plantée hier parce que j'ignorais ce qu'il y avait au programme. Marny rit en posant les autres verres. Oui, la nouvelle s'est répandue. On sait tous ce qui s'est passé, ou on peut le deviner. Pierre me répète toutes les activités quotidiennes, et je dois m'assurer que tu en sois informé. Il avait l'habitude de laisser un mot sur la porte de la chambre pour la dernière fille au père. Mais elle n'est pas restée longtemps. Marnie s'interrompit, se contrôlant comme si elle était sur le point de dire quelque chose, et puis s'était ravisée. Cassie était sur le point de demander ce qui lui était arrivé, mais Marnie reprit, comme si elle s'était remise sur les rails. De toute façon, vu qu'aujourd'hui est un jour férié, il n'y a pas d'activité. Elle se tourna vers la table, lissant les serviettes et mettant en place les couverts avec dextérité. Oh fit Cassie, déconfite à la pensée des longues heures creuses à venir. Si tu veux les sortir, il y a une fête foraine au village, poursuivit Marny. C'est à trois kilomètres. Tu sors de la maison, tu tournes à droite, puis tu prends la première à droite, et tu arriveras directement sur la place du village. Elle a lieu le même jour férié chaque année, et c'est très amusant. En tout cas, ça pourrait remonter le moral des enfants. Pourquoi ne pas demander à Pierre s'ils peuvent y aller C'est une bonne idée, merci, dit Cassie avec reconnaissance. L'occasion de poser des questions sur la mort de Diane était passée et elle n'était pas plus avancée. Il faudrait qu'elle le découvre une autre fois. Marny posa les pichets de café et de lait sur la table et prit son plateau. On sert du bacon au petit déjeuner les jours fériés. Si tu le disais à Marc, il adore le bacon. Elle fit un clin d'œil à Cassie avant de sortir en hâte par une porte latérale. Résolue à utiliser le bacon comme pot de vin, Cassie emporta le verre. Elle était en route vers l'étage quand elle croisa Pierre qui descendait. Aujourd'hui il était décontracté, en jeans, chaussures de sport et un polo noir portant un petit logo de designer. Bonjour, marmonna t-elle. Dans la lumière froide du jour, ses souvenirs de la nuit précédente étaient encore plus vifs. Pire, au lieu du bref salut auquel elle s'attendait, Pierre s'arrêta dans l'escalier, l'obligeant à faire de même. Bonjour, Cassie. J'apporte du jus d'orange à Marc, il a dit qu'il avait soif, expliqua t-elle mais elle se rendit compte avec une boule au ventre que Pierre n'avait même pas remarqué le jus. C'était elle qui le regardait. Cassie se mordit la lèvre alors que son regard se promenait sur ses cheveux brillants, son visage s'arrêtait sur le haut moulant et le jean le plus tendance qu'elle possédait. C'était comme s'il la voyait pour la première fois. Son air débraillé et épuisé des deux derniers jours, lui avait fourni un camouflage qui avait disparu maintenant. Vous êtes très jolie, la complimenta t-il. Elle balbutia un merci poli tout en se tassant intérieurement. Il fit un pas vers elle. Vos cheveux, c'est leur couleur naturelle? Il tendit la main, et elle réalisa qu'il allait vraiment la toucher. Oui, chuchota t-elle, la bouche soudainement sèche. Elle était coincée là, incapable de reculer parce que la rampe était juste derrière elle. Puis, à son grand soulagement, le cliquetis de talons retentit sur le palier au-dessus, et Pierre baissa sa main. Qu'allez-vous faire des enfants aujourd'hui demanda-t-il d'un ton plus formel. Marny a dit qu'il y a une fête foraine au village. Pourrais-je les emmener Bien sûr, c'est un peu loin, vous devriez prendre la voiture. Je vais vous montrer où sont les clés de la Peugeot, et vous aurez besoin d'argent de poche. Il sortit un portefeuille de sa poche arrière et lui remit un billet de cinquante euros. Cassie mit l'argent dans sa poche et s'écarta pour permettre à Margot de passer. Élégante comme toujours, dans une combinaison crème et des bottes en cuir noir, avec un foulard écossais autour du cou, elle adressa un signe de tête à Cassie, qui remarqua qu'elle avait l'air plus pâle que d'habitude. Bonjour, lui souhaita-t-elle. Margot fit un effort pour parler, mais à son grand étonnement, elle ne put prononcer un seul mot. Tout ce qui sortait, c'était un murmure rauque et enroué. Cassie se força à réfléchir deux coups à l'avance comme si elle jouait aux échecs. Elle savait ce qui était arrivé à Margot mais si elle ne l'avait pas su, il serait normal et poli de demander. Vous allez bien? dit elle, s'efforçant d'avoir l'air à la fois surprise et inquiète. Un peu de laryngite, expliqua Pierre avec aisance. Cassie hocha la tête. C'est très désagréable, Margot. Vous devez avoir très mal à la gorge. Marny pourrait vous apporter du citron et du miel? Marc n'a pas non plus l'air d'être dans son assiette aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il a la même chose, mais si c'est le cas, je ne l'emmènerai pas à la foire, ajouta-t-elle hâtivement. Sans un mot, Margot continua à descendre, et Cassie reprit son ascension avec le jus d'orange. Alors qu'elle se rendait dans la chambre de Marc, elle réalisa à quel point l'attitude abattue de Margot était dérangeante. Jusqu'à présent, la femme blonde avait été hautaine, autoritaire et dominatrice. Aujourd'hui elle semblait mentalement et physiquement écrasée. Sa gorge avait dû être violemment étranglée pour qu'elle ait des marques visibles ainsi qu'une perte totale de la voix. Cassie se demanda si elle avait su, quand elle avait rencontré Pierre, que cela ferait partie de l'arrangement, ou ne l'avait elle découvert que la première fois que les mains de Pierre s'étaient refermées autour de sa gorge? Si tel était le cas, elle avait dû faire le choix de vivre avec. Peut-être était ce de l'amour véritable, Bien que Cassie se dise cyniquement que c'était plus probablement l'argent, le prestige, le château mastoc et l'énorme bague en diamant qui lui permettaient d'endurer cela. Zeyn ne possédait pas plus d'un mètre carré de propriété. Une forte déglinguée était sa seule possession matérielle. Cassie l'avait aimé pour son charme et son charisme, réalisant trop tard que c'étaient les mêmes qualités volatiles que son père et qu'elles étaient tout aussi sujettes à un revirement instantané. La première fois que Zayn lui avait fait du mal, elle avait su qu'elle devait en rester là. En ouvrant la porte de Marc, elle se demanda, dans un instant d'introspection terrifiante, si elle aurait pu donner une seconde chance à Zayn s'il avait été aussi riche et puissant que Pierre. À dix heures et demie, Cassie sortit avec précaution le SUV Peugeot du garage. Antoinette et Marc étaient encore plongés dans un silence morose. Ella fut la seule personne joyeuse du groupe. Mais Cassie se souvint qu'elle ne savait pas que leur mère était morte, seulement qu'elle était partie. Elle supposa qu'Ella n'avait pas réalisé l'importance de la journée et qu'elle devait être trop jeune pour faire le lien. Elle avait vraiment besoin d'interroger Marnie là-dessus, dès qu'elle se sentirait plus en confiance dans leur amitié. L'humeur de Cassie reprit du poil de la bête tandis qu'elle roulait sur des routes pittoresques baignées par le soleil du matin, suivant une file de voitures prenant toutes le même chemin. Les routes étroites étaient bondées de véhicules garés pêle mêle, laissant à peine assez d'espace pour se faufiler. Cassie se gara du mieux qu'elle put, enfonçant le capot de la voiture dans une haie. Dès qu'elle ouvrit la portière, elle entendit de la musique, et le son joyeux du groupe sur scène parut remonter le moral de tous. C'est chouette, dit Antoinette en prenant la main de Marc et en sautillant le long de la route. Cassie suivit d'un pas plus calme avec Ella. On doit rester groupés! cria-t-elle, alors que les deux aînés se précipitaient sur la grande pelouse bordée de stands et de banderoles colorées. Puis, plus pragmatique, elle proposa Allons manger une crêpe. Les crêpes au chocolat furent un succès. Après quoi, les enfants se rendirent au kiosque de maquillage avant d'aller dans un théâtre en plein air assister à un spectacle de marionnettes. Debout au premier rang, tous trois se mirent à hurler de rire devant les bouffonneries des marionnettes. Cassie sourit, ravie et soulagée que la journée se déroule si bien. Elle avait l'impression qu'un lourd fardeau avait été ôté de ses épaules. Bien qu'il dût y avoir trois ou quatre cents personnes peuplant le terrain, profitant du temps frais et ensoleillé, Cassie constata que les trois enfants du bois semblaient avoir peu d'amis. Ils ne cherchaient pas la compagnie d'autres enfants et ne se mêlaient même pas à eux. En revanche, Cassie saluait tous ceux qu'elle croisait, se demandant qui était du coin et qui venait d'ailleurs, et si elle verrait l'homme âgé qu'elle avait rencontré la veille à la pépinière et qui lui avait dit qu'il connaissait les secrets de la famille Dubois. Quand elle aperçut une jeune femme rousse escortant des jumeaux, elle sourit largement, reconnaissant une autre fille au père. En effet, la femme s'approcha pour dire bonjour. Je suis Sarah de Londres, se présenta t-elle. Ces deux jeunes garçons sont de la famille Villiers, qui possède un vignoble à quelques kilomètres au nord d'ici. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je m'appelle Cassie et je suis arrivée il y a seulement deux jours, alors je suis encore en train de prendre mes marques. Je suis ici depuis presque un an. En fait, je pars en vacances la semaine prochaine. Ça te plaît pour l'instant? Je suppose qu'il est trop tôt pour le dire, mais je suis sûre que tu te plairas. Elle sourit. Je pense que je vais m'en sortir, dit Cassie avec précaution. Mais ça va quand même être un travail difficile. Elle jeta un coup d'œil vers Antoinette, toujours envoûtée par le spectacle de marionnettes, serrant les mains de Marc et d'Ella dans les siennes. Pour quelle famille travailles-tu demanda Sarah, curieuse en suivant son regard. La famille Dubois. Ils vivent dans un château à trois kilomètres d'ici. Je ne sais pas dans quelle direction, avoua Cassie, désorientée à force d'errer aux abords des stands. Sarah fronça les sourcils. Tu travailles pour eux pourquoi tu les connais? Sarah ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se tourna vers les jumeaux. Pierre Nicolas, voulez vous jouer à la pochette surprise? C'est au stand là-bas. Allez faire la queue, je vous rejoins dans une seconde. Les deux garçons partirent en courant, et Sarah se retourna vers Cassie. Tu dois faire très attention, avertit elle. Cassie se sentit soudain mal à l'aise, regrettant d'avoir mangé la riche crêpe au chocolat. Tu es la deuxième personne qui me dit ça. Je sais que la famille a d'énormes problèmes, mais je ne sais pas pourquoi on me dit toujours d'être prudente. De quoi me prévient on exactement? Tu le sais, toi? Sarah regarda autour d'elle avant de se pencher vers Cassie, qui s'efforça de l'entendre par dessus le brouhaha des voix et de la musique. Pierre, le propriétaire du château, a une très mauvaise réputation. À quel propos? Son infidélité. Tout le monde sait qu'il n'a jamais été fidèle à sa femme ni à sa nouvelle fiancée. C'est un propriétaire foncier riche et puissant qui attire de nombreuses femmes, et ce qu'il veut, il l'obtient. Cassie déglutit, se rappelant la porte de sa chambre qui s'ouvrait, la lumière allumée. La présence de Pierre dans son espace privé, la façon dont son attention s'était soudain focalisée sur elle ce matin, en la voyant apprêter. Je vois, dit elle d'une petite voix, il y a des rumeurs qu'il a des goûts inhabituels au lit, des trucs pervers. On dit que certaines des femmes avec qui il a eu des aventures ont rompu à cause de ça. Mais qui connaît la vraie histoire ou si leurs versions sont vraies? Après tout, si un homme riche te largue, tu vas dire aux gens que c'était ton idée, pas la sienne, n'est ce pas? Cassie acquiesça. Elle aurait pu ne pas croire Sarah si elle n'avait pas vu l'épreuve hier soir juste devant ses yeux. Elle savait que les rumeurs n'étaient pas que des oui dire ou des mensonges préjudiciables, mais elle ne pouvait prendre le risque de partager ses connaissances. Merci pour l'information, dit elle. Je ferai attention. D'où as tu entendu ça? Et y a t-il autre chose que je devrais savoir sur la famille? Sarah pinça ses lèvres, réfléchissant à la question de Cassie. Ma patronne en a parlé lors d'un déjeuner avec ses amis, et j'ai capté la conversation pendant quelques minutes. Elle fit un clin d'œil à Cassie, comme si elle avouait avoir tendu l'oreille. Je crois qu'elles ont mentionné d'autres problèmes avec cette famille. La discussion devenait très animée. Poursuivit-elle. Mais je n'ai entendu que des bribes, et bien sûr, je n'ai pas pu poser de questions après, puisqu'on ne m'a rien dit directement. Non, ça t'aurait certainement mis dans le pétrin, dit Cassie. Sarah leva les yeux. Mes garçons sont devant la queue. Je dois y aller. Il y a des prix à gagner. Bonne chance pour ta mission. Elle serra la main de Cassie avant de filer au stand de pochette surprise. Le spectacle de marionnettes était terminé, et les enfants se dispersaient. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? demanda Cassie à Antoinette qui haussa les épaules. Jeter un œil aux autres stands, je suppose. Avança-t-elle. En marchant dans l'allée, Cassie s'inquiétait de plus en plus de ce qu'elle avait entendu et de la façon dont Sarah avait décrit Pierre. Ce qu'il veut, il l'obtient. Elle avait déjà senti cette attitude arrogante en lui, son mépris des limites personnelles, voire sa méconnaissance totale de celle-ci. Que ferait-elle s'il lui faisait des avances? Elle était sûre qu'il n'irait l'avoir jamais fait, et qu'il croirait sa version plutôt que la sienne. Les enfants sentirent qu'elle était distraite, et leur humeur changea. Le temps qu'il fallut pour aller du spectacle de marionnettes au stand voisin, elle eut soudain affaire à trois monstres maussades et peu coopératifs, à l'opposé du trio heureux qui était arrivé sur le stand de crêpe. Je m'ennuie, annonça Marc. Il se pavana jusqu'au stand de pochette surprise et se balança sur la corde de sécurité. Cassie le tira en arrière comme la structure vacillait sur les côtés, les prix tombant des étagères. Marc, ne fais pas ça. Il faut respecter les biens des gens, le réprimanda Cassie, soudain consciente qu'elle ressemblait beaucoup à Margot. Je veux faire un truc amusant, se plaignit Marc. Il donnait des coups de pied aux cailloux du chemin et en projeta à la figure d'une petite fille qui passait à côté. Scrutant la zone à la recherche d'inspiration, Cassie remarqua qu'un match de foot était en cours au centre de la pelouse. Qui aimerait jouer? demanda t-elle. Antoinette haussa les épaules, mais Marc se précipita en direction du match. Tandis qu'elle suivait, Ella commença à se plaindre d'avoir mal aux pieds, tirant la main de Cassie et demandant à être portée. De son côté, Antoinette se mit à la harceler de questions. Dis moi, Cassie, ton père avait beaucoup de petites copines Qu'était-elle censée répondre à ça? Après sa récente conversation avec Sarah, elle pouvait deviner pourquoi Antoinette abordait un tel sujet, mais d'après le ton de sa voix, il était clair qu'Antoinette ne cherchait pas à rassurer, mais à provoquer Cassie. Il en avait une ou deux, répondit-elle brièvement. Je voulais dire pendant qu'il était encore marié à ta mère, précisa Antoinette d'un ton aigu et mielleux. Avait-il des copines à l'époque? Pas que je sache répondit Cassie, s'efforçant de sourire. En son fort intérieur, elle se recroquevilla de peur. Était-il possible qu'elle soit redevenue la cible du venin d'Antoinette Elle avait espéré qu'après leur conversation de la nuit précédente, Antoinette aurait abandonné sa vendetta, mais c'était clairement une trêve temporaire. « Mais si tu ne le savais pas, Cassie, penses-tu que tu aurais juste pu l'ignorer ?» Antoinette lui sourit doucement. Lèvres serrées, Cassie ignora la question et se concentra sur le match de foot. Marc avait foncé sur le terrain, ignorant le sifflet de l'arbitre et les efforts de l'organisateur pour l'affecter à une équipe. Il courait sur la pelouse, écartant les autres enfants de son chemin, criant victoire à chaque fois qu'il tapait dans le ballon. J'ai mal aux pieds se plaignit Ella bruyamment. Grinçant des dents, Cassie ramassa Ella. Elle était impossible à porter, se tortillant et remuant pour essayer de voir les festivités depuis son nouveau point de vue élevé. Cassie ne tint qu'une minute avant de devoir la reposer par terre. Le match de foot virait au chaos. Une mère en colère se précipita sur le terrain, ramassa sa fille renversée dans la mêlée. Elle se mit à vociférer des récriminations aux organisateurs. Marc, viens ici. Cria Cassie. Mais comme elle pouvait s'y attendre, le garçon l'ignora. Tu crois que ta mère a manqué à ton père, Cassie Antoinette lui balança un coup de coude au bras, exigeant sa pleine attention. Ou tu penses qu'il était content de profiter de ses copines sans elle Cassie entendit une exclamation choquée de la femme à côté d'elle, qui emmena rapidement son enfant. Elle fusilla Antoinette du regard, sentant sa peur se cristalliser en fureur, parce que d'où tout cela venait-il, bon sang Elle ouvrit la bouche, prête à asséner une réponse cinglante. Mais à ce moment-là, quelqu'un lui tapa sur l'épaule. Elle se retourna pour faire face à un arbitre en colère qui tenait Marc par le bras. Madame, êtes-vous responsable de cet enfant Oui, en effet. Consciente des regards curieux des spectateurs, Cassie sentit ses joues devenir cramoisies. S'il vous plaît, maîtrisez-le. Il n'est pas autorisé à retourner sur le terrain. Il a perturbé le jeu et causé des blessures. L'arbitre lâcha le bras de Marc, qui tenta aussitôt de dégarpir sur le terrain. S'y attendant, Cassie était prête. Elle réussit à attraper la capuche de son manteau et à le ramener. Ce n'est pas ainsi qu'il faut se comporter, les réprimanda t-elle, passant de l'expression rebelle de Marc à l'innocence suffisante d'Antoinette. Lâche moi. Marc se débattait sous son emprise. Antoinette tira sur son bras et demanda d'une voix perçante. Que veux-tu dire, Cassie? Avoir des copines Les hommes n'ont pas le droit d'avoir des copines Pourquoi tu penses que c'est mal, tu peux m'expliquer Alors que Cassie se tournait vers elle, essayant de trouver une réponse mesurée à la question, même si elle lui donnait envie de s'énerver, elle la lui fit perdre l'équilibre. La fillette saisit la ceinture de Cassie à deux mains et se pencha en arrière de tout son poids, de sorte que le cuir s'enfonça douloureusement dans le creux de son dos. J'ai besoin qu'on me porte, porte-moi maintenant. Gémit-elle. Antoinette se mit à glousser en pointant Cassie du doigt. Tu vas tomber, ou bien ton pantalon va tomber. Oh, tu as l'air si drôle! Les cris de Marc s'intensifièrent jusqu'à un braillement furieux et il martela le bras de Cassie avec ses poings. Lâche-moi, je veux jouer au foot avec les autres garçons. Je me fiche des règles, je te déteste. Comme il reprenait son souffle, la question acérée d'Antoinette se répéta. Tu ne m'as pas répondu, Cassie. « Tu ne sais pas que c'est impoli d'ignorer les questions des gens Pourquoi les hommes n'ont pas le droit d'avoir des copines Et est-ce que ton père s'amusait avec elles ?» Ces tourments continuels poussèrent finalement Cassie au-delà de ses limites. Sa ceinture était sur le point de se casser, son bras était meurtri et douloureux, et les mots moqueurs et le ton sucré d'Antoinette lui donnaient envie de la gifler. À la place, elle cria si fort que même Marc fut réduit au silence. « Arrêtez tout de suite » hurla-t-elle. Vous ne pouvez pas vous comporter ainsi dans un lieu public. Il y a des règles pour un comportement décent. Cassie avait conscience que d'autres têtes se tournaient, mais elle était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Vous connaissez les règles et vous les enfreignez délibérément. C'est injuste pour moi, pour les autres enfants, pour tous ceux qui essaient de profiter de leur journée. Je sais que ça fait un an aujourd'hui que votre mère est morte, mais ça ne vous donne pas une excuse pour agir ainsi. C'est totalement inacceptable. Cassie haletait. La gorge râpeuse à force de crier. Enfin, Marc avait la réprimandée, mais Antoinette souriait d'un air encore plus suffisant tout en observant la foule. En remarquant les regards choqués et les commentaires des badauds, Cassie se rendit compte, trop tard, du caractère blessant de ses paroles. Et puis elle entendit un sanglot derrière elle. Elle alla dévisager les yeux écarquillés. « Ma mère est morte » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ça veut dire qu'elle ne reviendra jamais? Pétrifiée, Cassie la regarda, incapable de trouver le moindre mot. Elle apprit un grand souffle et poussa un cri strident de pur chagrin. En prenant dans ses bras l'enfant hystérique, Cassie réalisa quelle terrible erreur elle avait commise. Dans sa colère, elle avait donné à Ella une vérité différente de celle de son père, et elle l'avait fait sans consulter Pierre sans connaître la vraie version des événements, ni même demander pourquoi Ella n'en avait jamais été informée. Pierre serait fou de rage. Désespérée, Cassie souhaitait pouvoir revenir en arrière et effacer ses paroles. Elle avait outrepassé ses limites avec cet accès de colère et de cruauté. Quand Pierre en entendrait parler, ce qui arriverait si tôt rentré, elle ne douta pas qu'elle serait renvoyée immédiatement. Chapitre 11. En conduisant jusqu'au château, Cassie dut se forcer à se concentrer sur la route. Ses pensées fragmentées tournoyaient en tous sens. Elle n'arrêtait pas de repasser la scène dans sa tête. Comment il avait été facile de crier ces paroles méchantes aux enfants sous le coup de la colère Comment les badauds avaient été choqués, lui adressant des gestes comme si c'était elle la méchante leur désapprobation ne serait rien en comparaison de ce à quoi elle pouvait s'attendre une fois rentrée à la maison. Elle a été blottie en silence sur le siège arrière, suçant son pouce. Dans le rétroviseur, Cassie l'observa avec inquiétude. Cassie, arrête-toi, on va se planter! grinça Antoinette, sortant de son flegme habituel. Cassie reporta son attention sur la route et pila pour éviter de rentrer dans la Renault devant elle, qui s'était arrêtée pour laisser traverser un troupeau de bétail. Marc se mit à rire, tout excité par le crissement des freins. <laughs> « Hihi Crash <laughs> » cria-t-il. « Crash 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 !» Il s'amusa tout le reste du retour en accompagnant bruyamment sa conduite. « Vroum Vroum Plus vite Hihi <laughs> Stop Crash !» La tête de Cassie palpitait lorsqu'ils arrivèrent au château et elle frissonna de désespoir. C'était une ratée. Elle manquait totalement de la patience et de la sagesse qu'il fallait pour contrôler ses enfants. Ce travail était au-delà de ses capacités. La seule chose qui lui apporta un peu de réconfort, c'est qu'il restait dans son portefeuille la monnaie des cinquante euros que Pierre lui avait donnés. Elle n'avait pas dépensé grand-chose à la foire. La plus grande partie de l'argent était encore là. C'était tout le liquide qu'elle possédait en ce moment, et si elle était congédiée sur le champ, elle en aurait besoin. Ce serait suffisant au moins pour prendre un taxi jusqu'à l'aéroport. Dès qu'elle gara la voiture, Antoinette et Marc sortirent et s'éclipsèrent. Seule avec elle là, Cassie réalisa que c'était l'occasion ou jamais de parler à la fillette et, avec un peu de chance, de limiter les dégâts avant qu'il n'ait à affronter la colère de Pierre. Mais alors qu'elle se retournait et rassemblait ses pensées, elle la sortit et claqua la portière. Cassie jura grossièrement en elle-même. Elle courut après les enfants, le stress la rongeant de l'intérieur. Antoinette et Marc avaient fait un détour par le verger et jouaient à chat parmi les arbres fruitiers, se bombardant mutuellement des quelques pêches trop mûres qui restaient. Cassie partit les chercher, respirant l'odeur piquante des feuilles sèches, soulignée par un soupçon de fruits pourris. À la maison. Ordonna t-elle avec lassitude. Ils abandonnèrent leur jeu et gambadèrent vers la porte d'entrée. Son estomac se serra quand Pierre l'ouvrit. Une vague de nausée lui donna envie de vomir, et elle déglutit péniblement. S'il vous plaît, les enfants, enlevez vos chaussures à la porte. Je ne veux pas de fruits écrasés à l'intérieur, avertit il. Pendant qu'Antoinette retirait soigneusement ses bottes, il demanda. Alors, tu t'es bien amusé? Cassie regarda ses propres chaussures, se demandant si elle aurait la force de faire face à la tempête qui allait suivre. Oui, papa, dit Antoinette d'un ton très doux. On a mangé des crêpes au chocolat, et t'as vu nos têtes? Je suis une princesse, et Marc est un chat. Elle a été une sirène, mais elle a abîmé sa peinture. Ne parvenant pas à croire ce qu'elle entendait, Cassie releva la tête. J'ai joué au foot et j'ai gagné. Cria Marc il jeta ses chaussures dans le couloir et courut à l'étage, ses pieds nus martelant sourdement le bois ciré. Réalisant que Pierre la regardait et que sa mâchoire béait sous le choc, Cassie se hâta de lui faire un sourire. Pourquoi n'avait il rien dit? Ils attendaient peut-être de pouvoir parler à leur père en privé. Mais tous deux avaient l'air sincèrement heureux, pas comme s'ils réprimaient quoi que ce soit. Pourtant, ils n'avaient sûrement pas oublié comment elle leur avait crié dessus. Ella entra en dernier d'un pas traînant et enleva ses baskets roses. Cassie attendit anxieusement. Antoinette et Marc avaient peut-être apprécié la journée, mais pour Ella, elle s'était terminée en catastrophe. Elle avait dû retenir ces mots larmoyants depuis que Cassie avait lâché la bombe. Maintenant, assurément, ils allaient éclater. Tu as aimé la fête foraine, Ella? demanda Pierre distraitement en redressant le cadre de la peinture à l'huile aux couleurs vives qui était accrochée au-dessus de la table du vestibule. Cassis se demanda comment il pouvait remarquer que le tableau était décentré d'un degré mais ne voyait pas à quel point les larmes avaient brouillé les hippocampes bleus peints sur les joues d'Allah en un flou méconnaissable. Faisant un petit signe de tête, Ella monta sans un mot à l'étage. Pierre ne la suivit même pas du regard. Trop fatiguée, je parie, dit-il, prenant du recul pour examiner le tableau. Elle a eu une matinée bien remplie, acquiesça Cassie. Elle avait l'impression que la conversation devenait surréaliste. Le nœud à l'estomac se desserra très légèrement. Bien qu'elle fût plus confuse que jamais, elle n'avait plus envie de vomir sur le champ. Pierre se tourna vers Cassie. Il y a un plateau de sandwich dans la salle à manger pour le déjeuner, et le dîner sera servi tôt ce soir. Ce sera un repas simple, juste du pain, du fromage et de la soupe, car la plupart des employés ont congé cet après midi. Je m'assurerai que les enfants soient prêts à temps, dit Cassie, et qu'elle la fasse une sieste cet après midi. Elle avait elle même besoin d'une sieste. L'épuisement profond qu'elle éprouvait soudain avait dû être causé par le stress émotionnel de la journée. Bien, fit Pierre distraitement, son attention déjà ailleurs. Il sortit de la maison les clefs de sa voiture cliquetant dans sa main. Cassie monta lentement à l'étage, forçant son esprit engourdi à réfléchir à ce qu'elle devrait dire aux enfants. Antoinette et Marc avaient peut-être vraiment oublié son accès de colère, et, en ce cas, il vaudrait mieux ne plus en parler. Mais elle ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit le cas. Bien que Marc ait la capacité d'attention d'un papillon et ne semble pas rancunier, Antoinette était tout le contraire. Elle avait probablement stocké l'incident dans un coin de sa mémoire et attendait le moment opportun pour le révéler victorieusement. Lorsque Cassie entra dans sa chambre et vit le flacon de pilules sur sa table de chevet, elle réalisa brusquement que sa fatigue, ses nausées et son brouillard mental n'étaient pas uniquement dus au stress. Elle avait oublié de prendre ses médicaments la veille au soir, et maintenant elle commençait à souffrir des effets qu'elle associa au fait d'avoir oublié de prendre sa dose. Elle ouvrit le flacon et mit un comprimé dans sa bouche avant de se rendre compte qu'il n'y avait pas d'eau dans le verre sur sa table de chevet. Ramassant le verre, elle se dirigea vers la salle de bain, mais en arrivant dans le couloir, elle s'entendit appeler par son nom. Cassie? Elle se retourna et vit Marny s'approcher, un bout de papier à la main. Au lieu de son uniforme gris habituel, la gouvernante portait un pantalon noir et une doudoune pourpre, elle était maquillée et ses cheveux étaient relâchés, ce qui la rendait beaucoup plus jeune et jolie qu'elle ne l'était quand elle travaillait. Apportait-elle des instructions de la part de Pierre se demanda vaguement Cassie, puis elle se rappela qu'elle venait de lui parler et qu'il n'avait rien dit, sauf que le dîner serait en avance. J'espérais te trouver avant de partir. Je vais à Paris pour la soirée, annonça Marny. Cassie hocha la tête. Le comprimé commençait à se dissoudre sur sa langue avec un goût infect qui fit ressurgir ses nausées. Elle leva la main, se retourna et se précipita dans la salle de bain. Elle versa de l'eau dans le verre et avala le comprimé en buvant un peu plus pour en diluer le goût. Désolée, dit-elle à Marny, qui l'avait suivie et attendait devant la porte, l'air inquiet. J'avais un comprimé dans la bouche. Oh, Marny hocha la tête en signe de soulagement. J'avais peur que tu aies quelque chose de mauvais à la fête foraine. Tu es toute pâle. J'ai mal à la tête, dit Cassie, ne voulant pas expliquer qu'elle prenait des médicaments contre l'anxiété. En tout cas, ce n'était pas un mensonge, sa tête la martelait. J'espère que ça ira mieux bien vite. Désolée de te déranger, mais j'ai quelque chose à te dire en privé. Elle prononça ces derniers mots à voix basse. Quoi Cassie sentit son cœur se serrer. Y avait-il autre chose qui pourrait mal tourner aujourd'hui? Pendant que tu étais sorti, quelqu'un a appelé la ligne fixe du château. C'était un jeune homme qui demandait à te parler. À moi? Cassie fronça les sourcils. Tu sais pourquoi? Sa meilleure hypothèse était que quelqu'un de la fête foraine avait reconnu les enfants et l'appelait pour lui reprocher la façon dont elle les avait engueulés en public. Il a dit qu'il était ton petit ami, Zeyn. Marnie lui donna le papier. Zayn, s'écria Cassie, incrédule. Ce n'est pas mon petit ami, c'est mon ex. Je ne lui ai jamais donné le numéro, je ne le connais même pas moi-même. L'agence n'aurait pas pu le donner à qui que ce soit, n'est-ce pas? J'ignore comment il a su que j'étais ici. Marnie haussa les épaules avec sympathie. Je suis contente d'avoir répondu, dit-elle. Pierre n'aime pas que les employés reçoivent des appels personnels sur la ligne fixe de la maison. J'ai dit à Zeyn que tu rappellerais quand tu serais en ville. Il vaudrait mieux que tu lui demandes de ne plus téléphoner ici. Voici son numéro et le message qu'il a laissé pour toi. Quel message? Elle contempla le papier. De l'écriture nette et inclinée de Marny, il était inscrit. Cassie, s'il te plaît, rentre à la maison. Ce soir là, Cassie n'arrêta pas de penser au message de Zane. Comment diable avait il su qu'elle était ici? Elle devait le rappeler de toute urgence. Maintenant qu'il connaissait le numéro, il essaierait sûrement de la joindre à nouveau, et la prochaine fois elle pourrait bien ne pas avoir autant de chance. Pierre et Margot ne descendirent pas dîner. Avec Marc dans son propre monde, Ella qui ne lui parlait toujours pas, et Antoinette qui lisait un livre à table, le souper se déroula dans le calme, mais Cassie fit de son mieux pour paraître joyeuse. Cette soupe n'est elle pas délicieuse? lança t-elle au trio silencieux. Il n'était pas difficile de complimenter la nourriture ici, qui était exceptionnelle. La soupe de bœuf et de légumes était riche et pleine de saveur. Seul son manque d'appétit l'empêchait de profiter pleinement du repas. Pas étonnant qu'elle n'ait pas eu faim alors qu'elle était stressée au maximum. C'était comme si chaque décision volontaire qu'elle avait prise jusqu'ici s'était avérée un désastre, et maintenant les décisions des autres, sur lesquelles elle n'avait aucun contrôle, allaient dans le même sens. Sachant qu'Antoinette serait à l'affût de tout signe de vulnérabilité, Cassie se força à manger un bol de soupe bien rempli et un morceau de baguette. Elle servit une portion généreuse aux enfants, mais bien qu'Antoinette et Marc aient nettoyé leurs assiettes, Ella toucha à peine la sienne. Tu es malade, Ella? demanda gentiment Antoinette, biaisant à Cassie un regard lui disant qu'elle savait exactement pourquoi Ella ne mangeait pas. Ella secoua la tête sans un mot. La journée a été longue, dit Cassie. Je suis sûre qu'elle se sentira mieux après une bonne nuit de sommeil. Tout va toujours mieux le matin. Elle sourit à Antoinette, les traits crispés par l'effort. Oh. Je n'en suis pas si sûre, répondit Antoinette. Parfois les choses peuvent être bien pires le matin. Cassie dut faire preuve de tout son self contrôle pour éviter de s'en prendre furieusement à Antoinette. Celle ci savait précisément comment la pousser à bout. Au lieu de cela, avec un énorme effort, elle garda son sourire bien en place. Si tout le monde a fini, montons à l'étage, dit-elle calmement. C'est l'heure d'aller au lit, et Ella, tu n'as pas encore pris un bain. Antoinette avait l'air déçue qu'elle n'ait pas mordu à l'hameçon, et Cassie ressentit une bouffée de satisfaction. Cassie fit couler un bain moussant à Ella pour essayer de lui remonter le moral, mais la fillette ne voulut même pas la regarder pendant qu'elle l'aidait à se laver. Elle contemplait les bulles dans l'eau du bain, et Cassie ne pouvait que deviner les tourments qui lui traversaient l'esprit. Je suis désolée, Ella, dit-elle doucement. Ce que j'ai dit t'a contrarié, et je me sens très mal à ce propos. C'était une terrible façon pour toi de découvrir ce qui est arrivé à ta mère. Tu dois te sentir très triste. Veux-tu que je te lise une histoire pour te remonter le moral Ella secoua vigoureusement la tête. Cassie la mit au lit, éteignit sa lumière, et ferma la porte, souhaitant pouvoir faire quelque chose de plus. Cette pauvre fille innocente avait déjà été blessée par sa famille toxique, et maintenant Cassie avait alourdi son fardeau. Elle était sûre qu'Alla ne lui ferait plus jamais confiance. Pourquoi le ferait elle? Elle avait cru que Cassie était son amie, de son côté, et Cassie l'avait trahie de la manière la plus cruelle possible. De retour dans sa chambre, elle remarqua à son grand désarroi qu'elle n'avait pas rangé ses pilules. Elle les avait laissées sur sa table de chevet, là où tout le monde pouvait les voir. En observant le flacon, elle éprouva une vague d'effroi. Il n'était pas plein, il manquait au moins quatre pilules. Cela signifiait quatre jours, et elle avait entamé le nouveau flacon juste avant de quitter les États Unis. Elle avait dû prendre sa pilule hier soir, et avait complètement oublié ce fait. Si c'était le cas, pourquoi pensait elle avoir omis une dose? Ses symptômes avaient ils été déclenchés par le stress insensé qu'elle avait subi? En y repensant, Cassie réalisa qu'elle ne se rappelait plus vraiment si elle avait pris ou non une pilule la nuit précédente, et que plus elle essayait de s'en souvenir, plus ça la rendait confuse. Son trou de mémoire l'effraya, mais elle se dit que c'était un effet du stress. Elle remit le médicament dans son tiroir et se coucha. Dormir semblait impossible. Son esprit galopait à toute allure. Elle s'inquiétait de ce que Zeyn allait faire, du moment où il rappellerait, et de la façon dont elle pourrait se rendre en ville pour contrôler la situation à temps. Puis il y avait Pierre dont il fallait s'inquiéter. Elle n'avait pas eu l'occasion d'installer un système d'alerte à la porte de sa chambre. Si elle arrivait enfin à s'endormir par pur épuisement, elle ne saurait pas s'il était revenu dans sa chambre. Cassie se releva dans son lit, haletante, luttant pour contrôler sa panique. C'était trop pour elle. Elle avait été affectée à une famille désastreuse et en grand conflit. Ses enfants avaient besoin d'une figure maternelle expérimentée et d'une aide professionnelle. Or il n'avait qu'elle. Et elle portait son propre fardeau. Elle n'avait réussi à survivre à son enfance toxique qu'avec l'aide de sa sœur aînée et n'y avait pas survécu sans dommage. Elle n'était pas assez forte ni capable pour gérer ça. Il fallait qu'elle démissionne. Dès que cette pensée lui vint à l'esprit, Cassie ressentit un énorme soulagement. Elle ne pouvait pas tenir plus longtemps. Elle n'était pas la bonne personne pour ce travail, cela lui causait du tort sur le plan émotionnel et, ce faisant, causait des torts plus graves aux enfants. L'appel téléphonique de Zane était un rappel opportun de ce qu'elle devait faire. Après tout, elle avait décidé de prendre un nouveau départ pour échapper à leurs relations violentes. Si son emploi actuel s'avérait tout aussi abusif, elle ne devrait pas hésiter à prendre la même décision. La seule question était de savoir comment partir, mais elle pourrait y réfléchir demain. Le petit matin était sombre et venteux, la journée allait être nuageuse. La brise faisait claquer sa fenêtre, et Cassie décida que courir lui tiendrait plus chaud que marcher. Elle enfila rapidement sa tenue de sport et un haut de survêtement, mit ses écouteurs et accrocha son téléphone à sa ceinture. Puis elle descendit tranquillement les escaliers et sortit, heureuse d'être la première debout. Elle découvrit un chemin qui serpentait sous les arbres et le suivit, courant lentement pendant qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devrait dire. Le coup de fil de Zeyn pourrait sûrement servir d'excuse. Il y avait une urgence familiale. S'il te plaît, rentre à la maison. Le seul problème, c'est qu'elle ne voulait pas dire à Pierre qu'il avait appelé au château. Elle devrait plutôt être honnête et franche, et expliquer que ce travail s'avérait trop exigeant pour elle, qu'elle n'avait pas réalisé que cela causerait tant de stress émotionnel, et que si elle ne pouvait pas s'occuper d'elle même, elle ne pourrait pas s'occuper de ses enfants. L'idée de faire une telle confession la terrifia. Pierre serait furieux comme on pouvait s'y attendre. Ou pire encore, il pourrait essayer de la convaincre de rester. Bien sûr, il y avait toujours la troisième option, qui était simplement de les quitter. Il suffisait de faire ses valises et de partir en laissant peut-être un mot pour expliquer pourquoi elle démissionnait. Marcher le long de la route, trouver le gentil vieil homme dans la pépinière, passer un coup de fil et prendre un taxi pour l'aéroport. Là, ce serait un vrai pari. Elle devait espérer que cela ne lui coûterait pas trop cher de changer son vol et qu'un de ses amis pourrait lui prêter de l'argent pour le faire de retour aux états-unis il faudrait qu'elle aille dans un autre endroit pour que zay ne la rattrape plus elle avait toujours voulu passer du temps en floride ou à la nouvelle-orléans même en hiver il pourrait y avoir des restaurants qui embauchent encore une fois décidée elle se mit à courir avec une détermination renouvelée son parcours la mena sur une piste en boucle qui faisait le tour des vignes celle-ci semblait être exploitée bien entretenu, et il y avait déjà un camion qui sortait lentement d'une grange en pierre sur le côté opposé. L'air était froid et alluma une senteur de fumée de bois provenant de la cheminée de la grange. Cassie réalisa qu'elle était sortie depuis presque une heure elle ferait mieux de rentrer pour que tout le monde soit à l'heure pour le petit déjeuner. Elle atteignit le sommet de la colline et trouva un chemin qui menait directement au château. À bout de souffle, mais en paix avec sa décision, elle entra dans la maison. La porte de sa chambre était entr'ouverte, et sa première pensée fut qu'une femme de ménage travaillait à l'intérieur, parce qu'elle l'avait laissée fermer. Puis, craignant que Pierre ou Margot n'y soient entrés pour la chercher, elle s'approcha plus prudemment. Elle ne pouvait pas les laisser soupçonner qu'il y avait un problème. Elle devait agir normalement jusqu'à ce qu'elle trouve le bon moment pour partir. Cassie ouvrit la porte en grand. Elle resta figée de stupeur en voyant la dévastation à l'intérieur. Pendant qu'elle était sortie, on avait saccagé sa chambre. Ses vêtements avaient été retirés des étagères et éparpillés sur le sol. Sa valise était renversée au milieu de la pièce. Ses médicaments, elle hoqueta d'horreur, avaient été déversés hors de leurs flacons et piétinés en fragments sur le carrelage. Cassie se fraya un chemin dans la pièce avec l'impression de vivre un de ses pires cauchemars, souhaitant que ce ne soit qu'un mauvais rêve. Elle ne pouvait pas croire qu'on ait pu violer son espace privé de cette façon. Elle n'aurait jamais imaginé que l'on puisse la détester autant. Son portefeuille avait été jeté sur le lit, ses cartes bancaires éparpillées sur les couvertures. L'argent à l'intérieur avait disparu. Alors qu'elle absorbait ce choc, elle découvrit quelque chose de pire encore. Elle avait planqué son passeport dans un compartiment fermé de son sac, lequel était maintenant grand ouvert. Cassie fouilla à l'intérieur d'une main tremblante, mais le compartiment était vide. On lui avait volé son passeport. Chapitre 12 Cassie s'effondra sur son lit, toute tremblante. Elle se rendit compte qu'elle était assise sur le matelas nu, parce que les couvertures avaient été arrachées du lit, les oreillers sortis des taies et jetés sur le sol. Elle respira profondément, s'efforça de ne pas éclater en larmes d'hystérie, sachant qu'elle ne pouvait pas se permettre de se laisser aller en ce moment. La personne qui avait saccagé sa chambre attendrait une réaction extrême. Elle espérait probablement que ses actions la pousseraient à bout. Cassie ne pouvait pas lui montrer à quel point cela l'avait secouée. Elle n'allait tout simplement pas la laisser gagner. Cette façon de penser l'aida à ne pas devenir folle. Au bout de quelques minutes, le choc reflua et elle retrouva assez de calme pour raisonner à nouveau. Il y avait une chance que son passeport ait été jeté dans la pagaille. Peut-être que cette personne mystérieuse n'avait pris que l'argent après tout. Cassie se leva et, marchant prudemment pour éviter les fragments de pilule, elle récupéra sa literie, la secoua et la remit sur le lit. Un par un, elle ramassa ses vêtements, les plia et les rangea dans le placard. Elle prit son sac et vérifia à nouveau toutes les poches avant de le ranger. Pas de passeport. Elle vérifia sous tous les meubles. Pas de passeport. La seule chose qu'elle trouva fut une pilule intacte, l'unique survivante de la destruction. Soigneusement, elle la récupéra et la remit dans le flacon. La façon dont sa chambre avait été saccagée ressemblait à un acte de pure colère, mais le vol de son passeport allait plus loin. C'était de la malveillance délibérée, qui n'aurait pas pu avoir pire conséquence pour elle. Sans son passeport, elle était vraiment prisonnière ici. Le remplacer serait un processus long et coûteux. Son manque d'accès aux e-mails et aux téléphones portables serait un énorme facteur de complications. Cassie se sentit écrasée comme si sa liberté lui avait été arrachée au dernier moment. Qui Qui aurait pu faire une telle chose Antoinette était sa principale suspecte, après avoir laissé tomber cette allusion trop si sirupeuse la veille au soir que les choses allaient s'aggraver. S'aurait pu tout aussi bien être l'étrange et impulsif Marc, cette destruction insensée qui le caractérisait. Et Cassie se rendit compte que cela pouvait aussi être l'œuvre de Margot, poussée par une rancune tenace. Elle aurait pu saccager sa chambre pour évacuer sa colère, mais pourquoi aurait-elle pris le passeport Si elle avait su ce que c'était, elle l'aurait laissé en place parce qu'elle avait manifestement hâte de se débarrasser de Cassie pour de bon. Cassie devait découvrir qui était derrière tout ça. Confronter la famille allait être sa prochaine démarche. Elle prit sa douche et se changea rapidement puis quitta sa chambre, décidant qu'elle ne raconterait pas ce qui s'était exactement passé tant que tout le monde ne serait pas réuni au même endroit. Cela lui donnerait l'occasion de voir toutes leurs réactions. Cassie ouvrit la porte de la chambre d'Antoinette pour la trouver toute bien habillée et prête à descendre au rez de-chaussée. Elle se rendit compte en entrant qu'elle avait oublié de frapper, mais Antoinette ne le remarqua pas. Était ce un signe? Bonjour, dit elle. Descends prendre ton petit déjeuner, s'il te plaît. Il y a quelque chose d'important que je dois dire à tout le monde. Elle scruta la jeune fille qui ne lui retourna son regard qu'un bref instant avant de détourner les yeux. Elle entendit des bruits de pas dans le couloir et se retourna pour voir passer Marc. Étonnamment, il s'était déjà habillé tout seul. Tu t'es levé tôt, Marc? remarqua Cassie, les soupçons grandissant en elle. J'ai faim. S'écria t-il, gagnant l'escalier au pas de course. Quand elle entra dans la chambre d'Ella, elle la trouva levée dans son lit, toujours en pyjama. Elle avait l'air d'avoir encore pleuré. Cassie l'aida à s'habiller en lui demandant si elle avait bien dormi ou si elle avait fait des cauchemars mais Ella resta maussade et sans sourire. Elle ne lui dit pas un mot. Pierre et Margot arrivèrent au petit déjeuner en même temps que Cassie escortait Ella en bas. Margot se couvrait toujours la gorge Aujourd'hui, elle portait un pull marin à col haut qui épousait parfaitement ses formes. En regardant de plus près, Cassie vit autre chose. L'ongle rouge parfait de l'index de la main droite de Margot était cassé, presque à vif. Cela aurait pu se produire pendant ses ébats avec Pierre, mais cela aurait tout aussi bien pu arriver en jetant violemment à terre les affaires de Cassie. J'ai quelque chose de très troublant à vous dire, annonça t-elle à Pierre lorsque tout le monde fut assis. Pierre prit le pichet de café et se tourna vers elle, fronçant légèrement les sourcils. Qu'est ce que c'est qu'Assi? demanda t-il. Je suis sorti courir ce matin, et pendant mon absence, quelqu'un est entré dans ma chambre. Tous mes vêtements ont été jetés par terre, mes articles de toilette et mes médicaments ont été renversés, on a écrasé et détruit mes comprimés, on a pris l'argent dans mon portefeuille, et on m'a aussi volé mon passeport. Sa voix se mit à trembler et se contrôla tant bien que mal, se demandant quelle réaction ces paroles allaient provoquer. Pierre était visiblement le plus choqué. Il claqua le pichet sur la table en jurant, fulminant. Vous êtes sûr? demanda t-il à Cassie incrédule. Évidemment. Sa voix tremblait terriblement à présent, et peina à en reprendre le contrôle. C'est arrivé il y a moins d'une heure. Avez vous pris des photos? Avez vous une preuve visuelle de ce qui s'est passé? Nous pourrions peut-être en avoir besoin interrogea Pierre. Non, non, je n'en ai pas j'ai tout rangé pendant que je cherchais mon passeport. C'est ce qui est important, rien d'autre. Je me fiche de l'argent qui manque, c'était juste la monnaie de ce qu'on avait dépensé à la fête foraine. Elle se détourna des traits sombres et furieux de Pierre, et regarda les autres. Antoinette, comme d'habitude, ne laissa rien transparaître en lui retournant tranquillement son regard. Marc avait les yeux écarquillés et la bouche ouverte mais elle n'aurait su dire si sa surprise était réelle ou feinte. Ella refusait toujours d'établir un contact visuel, faisant comme si elle ne l'avait même pas entendue. Les yeux baissés sur la nappe, elle semblait s'être retirée dans son propre monde. Margot tortillait une mèche de cheveux blonds entre ses doigts. Cassie lui trouva l'air bouleversé, mais elle répondait peut-être juste à l'humeur de Pierre. Un passeport perdu, c'est très grave, dit Cassie. En fait, je ne suis pas en règle sans lui, car je n'ai pas de carte d'identité. Je ne peux pas voyager, et ça va prendre beaucoup de temps et d'argent pour en avoir un nouveau. Margot s'éclaircit la gorge. Sa voix était rauque. Elle pouvait parler ce matin, mais avec peine. S'il manque de l'argent, c'est qu'il s'agissait probablement d'un membre du personnel, dit elle. En fouillant dans vos affaires comme ça, quelqu'un cherchait des objets de valeur. On m'a déjà volé des bijoux auparavant. Pierre acquiesça d'un signe de tête l'air sinistre. Si vous voulez, nous pouvons tous les renvoyer, suggéra Margot d'une manière aussi décontractée que si elle avait demandé qu'on lui passe le sel, et Pierre hocha de nouveau la tête en signe de soutien. Cassie fut choquée par les paroles de Margot, se demandant si ce licenciement général du personnel de maison était une menace, ou si cela s'était déjà produit auparavant. Cette famille serait elle vraiment prête à congédier tout son personnel après un incident présumé? Non, non, dit-elle précipitamment, je vous en prie, n'y pensez même pas. Ce serait trop injuste pour tous ceux qui sont innocents. Je ne voudrais pas qu'ils perdent leur emploi sans raison. Elle espérait que ces paroles pourraient avoir un effet sur quelqu'un autour de la table, mais maintenant tous se dévisageaient les uns les autres au lieu de la regarder, elle, ce qui rendait la chose plus difficile à distinguer. Une bonne idée, convint Pierre. Marny est en congé aujourd'hui, mais demain elle pourra vous aider. Cassie se dit qu'étant donné que la sympathique Marnie était ailleurs, elle serait hors de danger. On en reparlera demain, décida Pierre. Aujourd'hui c'est une journée chargée. Cassie s'attendait à ce qu'il en dise plus sur son passeport, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il prit un pain au chocolat avant de passer le plateau de pâtisserie, commentant leur qualité ce matin. Elle se rendit compte que la perte de son passeport avait chamboulé son univers, mais n'avait guère eu d'impact sur celui de Pierre. Elle était un bien jetable dans cette maison, et Pierre ne comprenait pas ou n'avait pas d'empathie pour sa situation désespérée. Peut-être l'avait-il déjà rejetée, comme toute autre scène venant d'un domestique. Que font les enfants aujourd'hui demanda-t-elle, réalisant que, puisque le passeport n'était plus un sujet de discussion, cette question serait attendue. Margot et moi les sortons ce matin. J'ai un rendez-vous d'affaires avec un nouveau client, dans sa belle galerie d'art près d'Orly. Sa femme et ses enfants se joignent à lui, et il m'a suggéré d'y amener ma famille aussi. Nous serons de retour pour un déjeuner tardif, puis les enfants auront des activités dans l'après midi, que j'expliquerai à notre retour. Merci. Votre sortie a l'air merveilleuse, dit Cassie automatiquement, mais tandis qu'elle parlait, les implications de ses paroles firent mouche. Elle serait au château, seule, toute la matinée. Vous devriez passer un peu de temps à la bibliothèque pendant notre absence, dit Pierre. Il y a une magnifique sélection de livres, en anglais et en français. Je vous remercie, je ferai ça, acquiesça Cassie, mais elle savait qu'elle n'en aurait pas l'occasion. Elle avait d'autres sujets plus importants à l'ordre du jour. C'était l'occasion parfaite, et la seule qu'elle pouvait avoir, de fouiller tout le château. Si elle retrouvait son portefeuille à temps, elle pourrait même reprendre ses plans et être partie pour de bon avant le retour de la famille Dubois. Chapitre XIII Cassie attendit impatiemment le départ de la famille. Cela parut prendre une éternité. Pierre faisait des histoires sur des détails. La tenue d'Ella ne lui convenait pas. Elle pouvait garder son manteau bleu, mais elle devait porter une robe plus élégante en dessous. Les cheveux de Marc durent être lissés à l'eau pour paraître nets, et on lui ordonna de mettre des chaussures propres. Elle fit de son mieux pour les préparer le plus rapidement possible, mais tous trois étaient visiblement réticents à faire cette sortie, et Allah ne lui disait toujours pas un mot. Finalement, tout le monde fut prêt à partir. Le gravier crissa sous les roues de la grosse Mercedes qui s'éloignait dans l'allée. Cassie monta dans sa chambre et observa la voiture jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue. Elle se dit que si elle détournait son regard ou clignait des yeux, ses plans n'iraient pas dans la direction qu'elle souhaitait. Elle larmoyait lorsque la voiture disparut de l'autre côté de la colline, mais elle n'avait pas cligné des yeux et ne pouvait qu'espérer que ce soit de bon augure. Les nerfs à vif, elle attendit encore cinq minutes pour être sûre, au cas où quelqu'un aurait oublié quelque chose. Quand elle fut certaine qu'il ne reviendrait pas, elle commença sa recherche. Elle alla directement dans la chambre du suspect le plus probable, Antoinette. En ouvrant la porte, elle sentit un regain de combativité. Elle n'allait pas laisser cette famille toxique la détruire. Elle allait faire tout ce qu'il fallait pour récupérer ses biens et s'échapper, même si cela signifiait fouiller leurs espaces personnels. La chambre d'Antoinette était si soignée que la jeune fille remarquerait immédiatement si quelque chose avait été déplacé. Cassie savait qu'elle devrait tout remettre en place tel qu'elle l'avait trouvé. Elle commença par l'armoire, fouillant les poches des vestes, les piles de vêtements, la valise rose d'Antoinette et son cartable. Puis elle inspecta le bureau, fouillant chaque tiroir. Un passeport était si petit qu'il pouvait être n'importe où. Elle ouvrit même le carnet d'Antoinette pour vérifier s'il n'était pas glissé entre les pages. Elle n'alla pas jusqu'à lire ce que la jeune fille avait écrit dans son journal intime. Cela elle n'était pas prête à le faire. Mais elle ne put s'empêcher de remarquer que l'écriture était inhabituellement désordonnée, les mots griffonnés en vrac. Donc, peut-être que ce journal était l'exutoire d'Antoinette à plus d'un titre. Contrainte de maintenir sa chambre et sa vie dans un état de perfection, ce devait être le seul endroit où elle s'autorisait à se rebeller. Vingt minutes frustrantes plus tard, Cassie quitta la pièce, fermant sans bruit la porte derrière elle. Elle espérait, s'attendait même, à ce que ce soit là qu'elle le trouve. Mais elle avait fouillé toutes les planques possibles, y compris sous le matelas et à l'intérieur de la tête d'oreiller. Et ne l'avait trouvée nulle part. La chambre de Marc était la suivante. Heureusement, dans cet environnement en désordre, elle n'avait pas besoin d'être aussi prudente. Tant qu'elle ne perturbait pas la formation de son armée de combat sur le sol, elle doutait qu'il s'aperçoive ou se soucie si quelque chose avait été déplacé. Tandis qu'elle fouillait dans le chaos de la boîte à jouets, Cassie se demanda soudain si Marc, à sa façon, résistait aussi aux normes déraisonnables de netteté et de perfection que son père lui avait imposées. Cela expliquerait certainement son comportement étrange et la façon dont il semblait chercher des occasions de perturber son environnement. La recherche méthodique de Cassie laissa la pièce un peu plus rangée qu'elle ne l'avait trouvée, mais ne donna aucun résultat. Son passeport n'était visiblement pas là elle commençait à perdre espoir quant à ses chances d'être partie avant le retour de la famille. Elle fouilla la chambre d'Ella aussi minutieusement et avec aussi peu de succès. Les salles de bain de l'étage supérieur ne donnèrent rien non plus. Il était possible que le passeport ait pu être caché à la hâte ailleurs dans la maison. Cassie descendit au rez de-chaussée, vérifiant d'abord chaque pièce pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'employés de maison qui y travaillaient. Une femme de ménage se demanderait sans doute pourquoi elle secouait les rideaux, fouillait dans les tiroirs et même dans les grands vases et amphores. Cassie soupçonnait que dans cette maison les murs avaient des oreilles et des yeux, et que si quelqu'un la voyait, ce serait immédiatement rapporté à Pierre. Essayant de rester discrète, elle parcourut le rez-de-chaussée. Elle inspecta très attentivement la salle à manger et le vestibule, se disant qu'on aurait pu y cacher rapidement le passeport avant de partir pour la matinée. Les recherches en bas lui prirent deux bonnes heures. À la fin, elle était épuisée, accablée par les dimensions de la maison et le nombre de pièces, ainsi que par la quantité de cachettes et de trésors qui s'y trouvaient. Elle se demanda combien d'entre eux étaient des héritages familiaux, ou si Pierre les avait acquis lui-même. D'après le bref indice qu'il avait donné au petit déjeuner au sujet d'une rencontre avec un propriétaire de galerie d'art, elle supposa qu'il était en quelque sorte impliqué dans ce business. Elle avait laissé de côté deux pièces, parce que le personnel les nettoyait, et toute une partie de la maison était fermée à clef. Mais si elle était verrouillée pour elle, elle le serait sûrement pour tous les autres. Et de toute façon, essaya t-elle de se consoler, pourquoi cacher un document là où une femme de ménage pourrait innocemment le trouver en nettoyant? Non, décida Cassie. Si tu avais volé quelque chose de si important, tu le garderais dans un endroit sûr, un endroit privé. Ce qui signifiait qu'il lui restait une pièce à fouiller. Une vague d'appréhension la balaya pendant qu'elle montait à l'étage et se dirigeait vers le bout du couloir. Elle avait gardé cette pièce en dernier, parce qu'y entrer lui donnait vraiment l'impression de franchir toutes ses limites. Elle espérait trouver le passeport avant de chercher ici, mais il n'en était rien. Maintenant, elle craignait d'avoir perdu trop de temps, parce que c'était le seul endroit où elle ne pouvait pas risquer d'être découverte. Elle frappa doucement à la porte de la chambre de Pierre. Bonjour. Appela t-elle, juste au cas où quelqu'un serait en train de nettoyer l'intérieur. Pas de réponse. Cassie n'entendit que le bruit de sa respiration haletante. Ce côté de la maison faisait face au jardin, non à l'allée, donc il serait plus difficile d'entendre la voiture revenir. C'était un autre facteur de complication. Avec un frisson de nervosité, elle ouvrit en grand la lourde porte en bois. La chambre était spacieuse et raffinée. La lumière pénétrait à travers une grande porte-fenêtre qui donnait sur un balcon orné. L'immense lit à baldaquin était couvert d'une dentelle finement ouvragée et plusieurs grandes toiles étaient accrochées au mur tapissé de papier ivoire. Elle sentait un soupçon du parfum de Margot dans l'air. Cassie traversa la pièce sur la pointe des pieds. Elle voulait éviter le lit, après la scène infernale dont elle avait été témoin, mais il fallait vérifier. Alors elle décida de s'en débarrasser en le faisant en premier. Elle tâta soigneusement sous les oreillers et couvertures, puis passa un peu de temps à reformer les oreillers et replacer le délicat couvre-lit en dentelle, juste comme elle l'avait trouvé. Elle savait que Pierre, avec son souci du détail, repérerait immédiatement toute imperfection. Les tiroirs de la coiffeuse étaient remplis de maquillage et d'une variété de parfums différents. Les flacons de verre étaient rangés côte à côte. Il devait y avoir au moins vingt parfums, mais son passeport ne se trouvait dans aucun des tiroirs. En se dirigeant vers le bureau, elle fut captivée par l'éclat brillant d'un presse papier en verre vénitien. Un bouquet de fleurs colorées était encastré dans le globe parfaitement limpide. Le soleil illuminant le verre, l'effet était hypnotisant, et pendant un long moment d'absence, elle fut trop envoûtée par sa beauté pour se rappeler l'urgence de sa recherche. Puis un bruit à l'extérieur la fit sursauter et le sort fut rompu. Elle se donna une gifle mentale. Que diable faisait elle à s'arrêter pour admirer des objets d'art alors qu'il y avait tant en jeu et que sa présence ici était si risquée? Elle fut consternée de s'être laissée si facilement distraire. Était ce un autre signe qu'elle s'était trompée dans la prise de ses médicaments? Si Pierre entrait, elle ne pourrait pas expliquer sa présence ici. Ce n'était rien moins que criminel. Elle retint son souffle en tendant l'oreille, mais quand elle n'entendit rien d'autre, elle se ressaisit et poursuivit sa traque, se dépêchant maintenant. Dans le bureau, à droite de la chambre, Cassie trouva un téléphone fixe. Il reposait sur le bureau en marbre, à côté de quelques dossiers bien étiquetés. Elle le regarda avec nostalgie, sachant qu'elle ne pouvait pas l'utiliser car Pierre pourrait vérifier le dernier numéro composé. L'armoire de classement en bois dans la pièce était fermée à clef, mais elle espérait que cela signifiait que Margot ne pouvait pas y accéder non plus. À gauche de la chambre se trouvait un immense dressing, les murs bordés de placards remplis de vêtements. Paniquant à l'idée de manquer de temps, Cassie fit une recherche aussi rapide que possible, passant les mains sur toutes les étagères et dans les poches du mieux qu'elle pouvait. Elle ne trouva rien. Cassie soupira longuement. Pour être honnête avec elle même, elle ne s'attendait pas à ce que le passeport soit caché ici, c'est pourquoi elle avait laissé cette pièce pour la fin. Pour autant qu'elle sache, la personne qui avait pris le passeport l'avait peut-être simplement détruit, jeté au feu ou dans la poubelle débordante de la cuisine, elle perdait peut-être son temps depuis le début. Elle devrait plutôt consacrer toute son énergie à l'élaboration d'un plan B, quel qu'il soit. Il faudrait certainement contacter l'ambassade pour savoir ce qu'elle devait faire pour obtenir un passeport de remplacement. Mais alors qu'elle retournait à la porte, elle se rappela soudain qu'elle n'avait pas vérifié une cachette très évidente, sous le lit. Elle aurait dû y jeter un oeil immédiatement, après tout, c'était sa cachette de prédilection dans le passé, lorsque les choses tournaient mal. Accroupie sur le plancher lustré, Cassie regarda sous le lit, crispée en entendant un bruit sourd à l'extérieur. S'exhortant au calme, elle ne pouvait pas se laisser distraire par chaque petit bruit maintenant qu'elle avait presque fini, elle reprit sa fouille. Il n'y avait rien, mais elle remarqua un tiroir long et étroit, inséré dans le cadre du lit. Elle l'ouvrit et observa son contenu, sentant son dos se hérisser de terreur. Le tiroir contenait des bâillons en cuir, des fouets, des cordes et des harnais à l'allure vicieuse, ainsi que des écharpes en soie comme celles qu'elle avait vues par le trou de la serrure. Il y en avait plusieurs de différentes couleurs vives, soigneusement pliées dans un coin. D'autres objets aussi. Des menottes, des bandeaux, des pinces en métal brillant. Elle ne voulait pas s'imaginer à quoi elles pouvaient servir. Elle sortit l'une des écharpes. Elle était d'une couleur rose foncée, d'un tissu très léger au toucher. Sa douceur contrastait avec la lourdeur et la dureté des harnais lorsqu'elle les écarta. Les chaînes qui y étaient attachées cliquetèrent bruyamment lorsqu'elle les bougea, et elle sursauta devant ce bruit inattendu. Accroupie là, elle se sentit incroyablement vulnérable. C'était peut-être sa propre culpabilité d'avoir fouillé dans ce tiroir caché, mais elle fut soudainement certaine qu'on la regardait. Cassie remit soigneusement en place les harnais et l'écharpe après avoir vérifié qu'il n'y avait rien de caché là-dessous. Puis elle referma le tiroir avec précaution et se leva, souhaitant n'avoir jamais vu son contenu. Un coup d'œil par le trou de serrure était une chose, mais tomber sur un stock entier d'équipements de bondage était tout autre chose. Elle ne devrait jamais, jamais laisser Pierre savoir qu'elle avait découvert cette cachette secrète. Elle marcha à pas de loup jusqu'à la porte de la chambre, mais lorsqu'elle l'atteignit, elle entendit un bruit plus fort et plus familier qui la fit se figer. Elle attendit, prise de panique, priant pour avoir mal entendu. Puis elle entendit de nouveau, confirmant ses pires craintes. C'était le cri indubitable de la voix de Marc qui résonnait dans le couloir. Elle avait passé trop de temps à chercher, et maintenant la famille était revenue, et elle était coincée dans la suite parentale. D'un moment à l'autre, Pierre pourrait ouvrir la porte. CHAPITRE XIV Une porte claqua plus loin dans le couloir, et Cassie entendit Marc crier à nouveau. Elle recula dans la chambre de Pierre, cherchant instinctivement à se cacher, mais dans cet espace ordonné et minimaliste, il n'y avait nulle part où aller. Pierre et Margot pourraient gagner directement la salle de bain moderne ou le bureau ou le dressing, et ils la verraient aussitôt dans ce cas. Se cacher sous le lit mènerait tout simplement au désastre. Cassie tenta de se rassurer en se rappelant combien Marc aimait courir devant les autres. Elle espéra que le reste de la famille était toujours dans l'escalier, et dans ce cas il vaudrait mieux qu'il la trouve en train de quitter la pièce plutôt que d'attendre à l'intérieur. Elle devait prendre une décision maintenant, parce qu'il se demandait peut-être déjà où elle était et s'attendait à ce qu'elle aille aider les enfants sitôt arrivés. Elle ouvrit la porte de la chambre, se glissa dehors et la referma rapidement derrière elle. Puis elle se dépêcha de longer le couloir et de tourner à l'angle. Son cœur battit la chamade lorsqu'elle entendit la voix de Pierre venant de la chambre de Marc, et elle réalisa à quel point elle avait failli rater son coup. Le garçon avait dû appeler son père dans la pièce en passant. Peut-être avait-il voulu que Pierre admire son bataillon de petits soldats. S'il n'y avait pas eu Marc, Pierre l'aurait certainement découverte là-bas. Peut-être même qu'il serait entré alors qu'elle fouillait dans ce tiroir secret, et elle n'osa pas imaginer quelles en auraient été les conséquences. Elle ne pouvait pas risquer une nouvelle imprudence de ce genre, pas même pour retrouver son passeport disparu. Antoinette n'était pas dans sa chambre, celle d'Ella était ouverte. En regardant à l'intérieur, elle remarqua que la fillette était déjà passée de sa robe élégante à la salopette en velours côtelé qui semblait être sa préférée, ce qui voulait dire que la famille était à la maison depuis plus longtemps qu'elle ne le pensait. Elle salua Ella d'un bonjour amical. Tu veux aller te promener dans le jardin avant le déjeuner, Ella? demanda t-elle mais sa seule réponse fut de se détourner. Dépitée, Cassie retourna dans sa chambre d'un pas lourd. La matinée avait été un échec total ses recherches avaient failli s'achever en catastrophe, son passeport était toujours introuvable, et le silence d'Ella était continuel. Regardant par la fenêtre, elle vit que le temps devenait de nouveau gris et nuageux, elle enfila un haut de survêtement, rangea les vêtements qu'elle avait jetés plus tôt dans son placard et passa du temps à ramasser les comprimés écrasés et à balayer les résidus poussiéreux avec des mouchoirs jusqu'à ce que le sol soit propre. Après avoir tout rangé, elle remarqua que le flacon contenant la seule pilule intacte était toujours sur sa table de nuit. Elle aurait dû le ranger ce matin, car elle ne voulait pas que ses médicaments traînent à la vue de tous. Cassie ouvrit le tiroir de la table de chevet et laissa échapper un hoquet. Okay. Son passeport était là. Elle cligna des yeux, incapable de croire ce qu'elle voyait. Il était là, bien rangé dans le tiroir, sa couverture en relief doré intacte. Comment diable lâcha Cassie à voix haute. Elle le sortit du tiroir, ayant besoin de sentir sa forme rassurante dans sa main. En feuilletant les pages, elle constata que son visa était toujours là et qu'aucune des pages n'était froissée ou déchirée, et n'avait pas été du tout trafiquée. L'inquiétude frénétique qui la consumait depuis le matin se dissipa, et elle se sentit euphorique de soulagement. Quels que soient les autres problèmes qu'elle pouvait avoir, et elle en avait beaucoup, la présence de ce petit document à la couverture marine lui avait rendu le pouvoir de prendre des décisions. Elle n'était plus prisonnière dans cette maison hostile. Cassie se demanda tout à coup si le passeport n'avait pas été dans le tiroir depuis le début. Elle se rappela que lorsqu'elle avait défait ses bagages, elle avait pensé que le sac n'était pas l'endroit le plus sûr où le laisser et qu'elle devait le mettre ailleurs, ce qu'elle avait sans doute fait, puis avait oublié. Elle n'avait pas vérifié les tiroirs après avoir trouvé sa chambre saccagée parce qu'elle avait vu le compartiment à fermeture éclair du sac grand ouvert, et qu'elle avait supposé qu'il avait été pris là. Or il était ici, et le soulagement de Cassie se tinta d'inquiétude, car comment avait elle pu le ranger et ne pas s'en souvenir par la suite? Perdait elle vraiment la tête? Confuse, elle se frotta le front, essayant de reconstituer exactement ce qu'elle avait fait pendant le déballage, mais ses pensées furent interrompues par le bruit de la porte de sa chambre. En levant les yeux, elle remarqua Pierre debout dans l'embrasure. Cassie se sentit rougir de honte en réalisant qu'elle tenait le passeport qu'elle avait accusé un membre de sa famille d'avoir volé plus tôt. Je. Je viens tout juste de le retrouver, dit elle. Il était dans le tiroir de ma table de chevet. L'argent manque toujours, mais au moins le passeport a été retrouvé. Elle eut un sourire forcé. Pierre entra et referma la porte derrière lui. Sa présence imposante faisait paraître la pièce plus petite, et bien qu'il eût le regard sévère, Cassie n'avait aucune idée de ce qui n'allait pas. Quelque chose avait dû arriver s'il était venu lui parler en privé. On lui avait peut-être raconté ce qu'elle avait fait à la fête foraine, et il était peut-être venu pour la virer. Je présume que vous avez cherché le passeport, Cassie, attaqua Pierre. Elle déglutit. Elle n'avait pas été assez prudente. Une des femmes de chambre avait dû la voir fouiller dans les pièces du rez-de-chaussée. Oui, avoua-t-elle, décidant de s'en tenir le plus possible à la vérité. J'ai pensé que je l'avais peut-être laissé tomber pendant que Margot me faisait visiter les lieux le soir de mon arrivée. Pierre réfléchit quelques instants à ses paroles. Son silence était troublant, et elle ne pouvait pas déchiffrer l'expression dans ses yeux bruns rapprochés. Penses-tu l'avoir laissé tomber dans ma chambre, Cassie demanda-t-il. Elle sursauta visiblement à ses paroles, un clair aveu de culpabilité. En plus, il la tutoyait à présent. Je, commença t-elle, mais les mots lui échappèrent. Ce n'était pas vraiment une question, plutôt un constat. D'une façon ou d'une autre, il avait dû la voir ou l'entendre là-bas. Tu n'as peut-être pas tout remarqué dans cette pièce, poursuivit il. Le tiroir où Margot garde ses bijoux, par exemple. Il est très bien caché. Elle ne pouvait pas croiser le regard de Pierre, elle baissa les yeux sur ses mains, regardant son ongle creusé si profondément dans sa cuticule qu'elle crut que du sang allait couler. Non, je n'ai pas remarqué de tiroir à bijoux. J'ai jeté un coup d'œil très rapide. Je suis vraiment désolée. C'était impardonnable de ma part d'y être entrée. Je voulais, eh bien, je voulais m'assurer d'avoir cherché partout. Mais tu as peut-être trouvé un autre tiroir, suggéra-t-il d'un ton décontracté en s'asseyant sur le lit à ses côtés. Elle le fixa paniquée. Comment avait-il deviné qu'elle avait découvert ce tiroir secret Elle était sûre que la porte de la chambre ne s'était pas ouverte. Il avait peut-être arrangé le contenu d'une certaine façon. Elle avait fait de son mieux pour tout remettre en place, mais elle était sous le choc et s'était dépêchée, se rendant compte qu'elle n'avait plus de temps. S'il en était sûr, elle ne ferait qu'empirer les choses en le niant. Il valait peut-être mieux ne rien dire du tout et s'accrocher jusqu'à ce que sa colère s'apaise. À sa grande surprise, elle remarqua que les traits épais de Pierre n'étaient pas empreints de colère. Il la regardait plutôt avec la même expression qu'elle avait vue le matin précédent, quand il l'avait croisée dans l'escalier. Penses-tu que les règles sont faites pour être transgressées, Cassie dit-il à mi-voix, comme s'il ne voulait pas qu'elle porte plus loin que sa chambre, ou même au-delà du lit. Elle secoua la tête dans un violent déni, mais il insista. Je crois que tu le penses, et moi aussi. Ça rend la vie plus intéressante. Il tendit la main et écarta ses cheveux de son visage, puis lui pinça doucement la joue. Son ton était enjoué, mais ses paroles ne l'étaient pas. Je crois que fouiller dans la chambre de ton employeur est une offense inadmissible. Ce pourrait même être un délit. Après tout, des bijoux ont disparu dans le passé. Penses-tu que nous n'avons rien fait contre le coupable depuis La police locale serait intéressée d'entendre parler de tes méfaits. Tu te demandes si j'ai des preuves de ce que tu as fait. Peut-être devrions nous déjà en informer la police. Cassie le fixa de nouveau, la peur s'épanchant en elle alors que les menaces douces de Pierre lui révélaient ce dont il était capable. Je vous en prie, non. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que votre chambre était hors limite, je ne savais pas que c'était une règle. Maintenant que je le sais, je n'y retournerai plus jamais. Oui, tu as enfreint les règles sans aucun doute. Mais cette fois je serai indulgent envers toi. Je vais croire que tu as agi en toute innocence. Je ne dirai rien et toi non plus. Je vais faire comme si tu ne faisais que jouer avec moi. Mais un jeu doit être joué par deux personnes, non Donc la prochaine fois, dans notre jeu, ce sera à mon tour d'enfreindre les règles. Tu crois que tu vas aimer ce que je vais faire Je. Non, pas vraiment, bégaya-t-elle. Le visage en feu, elle était paralysée par l'indécision, ne sachant pas si l'option la plus sûre serait de rester tranquille ou de crier à l'aide. Se taire semblait l'alternative la moins terrifiante, même si elle était consternée par ce que Pierre insinuait. Oh. Mais tu as tort, Cassie, parce que je crois que tu vas aimer. Son ton était taquin maintenant, et ses doigts vagabondaient sur son visage comme si c'était sa propriété, caressant sa mâchoire, son front, touchant ses lèvres, enveloppant son cou, puis il baissa la main et lui toucha la cuisse, et Cassie sentit chaque muscle de son corps se tétaniser. Elle décida qu'elle allait crier, peu importe les soucis que ça lui causerait. Elle devait mettre un terme à cette situation avant qu'elle ne dégénère. Mais alors qu'elle rassemblait son courage, il ôta sa main et émit un rire rauque. J'ai hâte de la prochaine fois, lui chuchota t-il. Puis il ajouta en clignant de l'œil. Et ne t'inquiète pas. Tout comme je peux punir, je peux aussi récompenser, et je te récompenserai généreusement pour jouer le jeu avec moi. Il appuya son doigt sur ses lèvres. Je vois que tu comprends maintenant comment vont les choses. Il sourit. Le lit grinça quand il se leva, et un moment plus tard il sortit et referma doucement la porte derrière lui. Cassie laissa échapper un long soupir tremblant. Elle frotta son visage là où les doigts de Pierre s'étaient promenés, cherchant désespérément à effacer son toucher. Elle comprenait maintenant pourquoi Marnie attachait ses cheveux et venait sans maquillage au travail, et pourquoi toutes les femmes de ménage semblaient se fondre dans le décor et rester invisibles. Elle était terrorisée par cette rencontre et les mots d'adieu de Pierre l'avaient entachée. Quant à elle, elle n'aurait pas pu gérer la situation plus mal. En état de choc, elle l'avait laissé faire. Et son silence lui avait donné la permission tacite de continuer. Trop tard, Cassie réalisa qu'elle aurait dû crier. Chapitre 15 Après ce qui s'était passé dans sa chambre, Cassie ne savait pas comment elle allait affronter Pierre au déjeuner. Comment diable pourrait-elle faire comme s'il ne s'était rien passé et se comporter de façon quasi normale? À son grand soulagement, Lorsqu'elle emmena Marc et Ella en bas, elle découvrit qu'Antoinette et Pierre venaient de finir de déjeuner et se préparaient à quitter la table. Antoinette a une leçon de piano à Nanterre cet après-midi. Je l'emmènerai car j'ai une réunion d'affaires non loin de là, annonça Pierre. Son ton était formel, comme s'il ne s'était jamais assis près d'elle sur son lit et n'avait jamais murmuré ces paroles suggestives. Et moi j'ai foot. lui rappela Marc. Le football est au club sportif, près du village où la fête foraine a eu lieu dit Pierre à Cassie. Prenant un bloc-note sur le buffet, il nota l'adresse et les directives pour elle. L'entraînement de foot commence à quatorze heures et se termine à seize heures. Vous n'avez pas besoin de rester à regarder, d'autant plus que le temps devient de plus en plus froid. Ella, j'en suis sûre, préférerait rentrer à la maison. C'est une bonne idée, acquiesça Cassie. On peut faire du coloriage ensemble, Ella, ou peut-être que tu aimerais faire de la pâtisserie dans la cuisine? Cassie ne faisait des suggestions que pour combler le silence. Elle était sûre qu'elle-là ne lui répondrait pas, ce qui fut le cas. Heureusement, Pierre ne sembla pas le remarquer. Je dois aller chercher des documents dans mon bureau, dit-il à Antoinette. Si tu es prête, attends dans la voiture. Ils quittèrent la pièce et Cassie découvrit le plat de service et donna aux enfants des tranches de quiche lorraine avec une salade verte en accompagnement. Pendant qu'elle mangeait, elle finalisait mentalement ses plans pour partir. Elle ne pouvait pas abandonner Ella ici, toute seule, donc elle devait attendre que Marc revienne de son entraînement. Pierre et Antoinette seraient-ils de retour d'ici là Elle n'avait aucune idée de la distance qui la séparait de Nanterre. Elle ne savait pas non plus où se trouvait Margot, mais elle supposa qu'elle était probablement sortie de nouveau. Pierre aurait-il pris le risque de faire ce qu'il avait fait dans sa chambre si Margot avait été à la maison Marc semblait impatient d'aller au foot, malgré le temps qui empirait. L'après-midi devenait froid et venteux, et en l'accompagnant du parking au terrain de sport, Cassie fut soulagée de ne pas devoir attendre sur un banc en bois, avec seulement un léger belvédère comme abri. Elle avait refusé de sortir de la voiture, et ils rentrèrent au château en silence. Alors qu'elle garait la voiture, Cassie décida que, d'une façon ou d'une autre, elle avait besoin d'arranger les choses. Elle avait deux heures à passer avec Ella, probablement le dernier moment en privé qu'elle aurait jamais avec la fillette. Elle devait s'excuser et faire la paix avant de partir. Elle suivit Ella jusqu'à sa chambre, et quand celle-ci s'assit sur son lit, Cassie prit une chaise et s'installa face à elle. Ton ours en peluche a l'air de vouloir entendre une histoire, tenta-t-elle. Veux-tu que je lui en raconte une Peut-être que ça te plairait aussi. Ella secoua la tête je pourrais te montrer comment découper des flocons de neige dans du carton, et on pourrait les colorier. On pourrait les décorer de paillettes et les accrocher à ton abat jour. Sa suggestion fut accueillie en silence. Ella balança ses pieds, donnant des coups dans le cadre du lit. Cassie était à court d'options cuisiner était la seule idée qui lui restait, et elle ne croyait pas pouvoir persuader Ella de descendre pour s'y essayer. Auquel cas, il était temps d'être honnête. Ella, je m'excuserai autant de fois qu'il le faut, mais c'est à toi de décider si tu dois me pardonner, dit-elle doucement. J'aimerais être ton amie avant de partir, je ne veux pas te laisser sur une dispute. Ella la fixait à présent de ses grands yeux bleus. Où est-ce que tu vas demanda-t-elle d'une petite voix. Je rentre aux États-Unis, avoua Cassie. J'ai décidé que je ne suis pas la bonne personne pour m'occuper de toi. Tu as besoin de quelqu'un de mieux, quelqu'un d'aimant, de patient et de gentil. Cassie avait l'intention de décrire plus en détail le genre de Marie Poppins qu'elle espérait voir la remplacer, mais elle n'en eut pas l'occasion car elle fondit en larmes. « Ne pars pas » supplia-t-elle en sanglotant. « Je le dois. » Cassie vint s'asseoir à côté d'elle sur le lit et la serra fort dans ses bras. La culpabilité la submergea quand elle se rendit compte que le corps d'Ella frémissait de sanglots. « Pourquoi tu dois partir ?»« Parce que je ne suis pas heureuse ici. » Répondit-elle. Je suis très malheureuse, et à cause de ça, je ne peux pas prendre soin de toi correctement. Frottant doucement le dos d'Ella, elle contempla la fenêtre éclaboussée par la pluie, sentant les larmes lui monter aux yeux. T'es malheureuse parce qu'on a saccagé ta chambre Oui, c'est en partie la raison. Je suis désolée, gémit Ella. C'était moi, c'est moi qui l'ai fait. Toi Cassie perçut l'incrédulité dans sa propre voix. Elle écarta les bras d'Ella, voulant voir son visage. Était-elle sérieuse Avait-elle vraiment fait ça J'étais trop en colère. Ella la regarda, les yeux remplis de larmes, et Cassie n'y vit que de la franchise. Je voulais te faire la pire chose possible, mais après j'ai compris que tu serais fâchée et j'avais peur que tu partes, tout comme Anna, la dernière dame qui s'est occupée de nous. Alors j'ai pris ton argent et ton passeport et je les ai mis dans la poche de mon manteau, puis je suis retournée au lit et j'ai fait semblant de dormir. Cassie cligna des yeux, l'esprit bouillonnant de questions. Pourquoi Anna est partie Je ne sais pas. Un jour elle m'a montré son passeport et m'a dit qu'elle rentrait chez elle demain, puis elle est partie. Je l'aimais bien aussi, elle m'a manqué, mais je t'aime plus. C'était très malin de ta part de te rappeler ce qu'est un passeport. Mais tu m'as beaucoup contrarié en le dérobant, la réprimanda Cassie. Je te l'ai rendu. Ton argent est là aussi. Je gardais tout en sécurité dans ma poche. Elle descendit du lit, prit son manteau sur le dossier de la chaise et tendit à Cassie une liasse pliée serrée. Cassie contempla les billets, les dépliant lentement du bout des doigts. Tout est de ma faute. Je t'ai rendu triste et maintenant tu t'en vas. S'il te plaît, ne pars pas, supplia Ella. Elle je ne suis pas la personne qu'il te faut, répéta-t-elle. Mais la fillette secoua résolument la tête. Si tu l'es, t'es la meilleure, insista-t-elle. On t'aime tous, sauf Antoinette, mais elle n'aime personne. Même Marc a dit à papa ce matin que tu es très gentille. Cassie fourra l'argent dans la poche de son jean, se sentant perdue. Elle n'avait pas réalisé qu'elle était si appréciée par les jeunes enfants et si indispensable. Elle, en particulier, avait des problèmes beaucoup plus complexes qu'elle ne le pensait. Quelle chance avait-elle de les surmonter en vivant dans une maison si instable Elle était encore innocente et Cassie admirait le courage qu'il lui avait fallu pour avouer ce qu'elle avait fait. Cela signifiait beaucoup. Si elle partait maintenant, Ella se sentirait coupable et cela ajouterait plus de poids à un fardeau émotionnel qu'aucun enfant de cinq ans ne méritait de supporter. Cassie ne savait que trop bien quelles en seraient les conséquences à long terme. Elle pourrait sûrement survivre ici un peu plus longtemps. Si elle partait dans quelques jours, elle-là ne s'en vaudrait plus autant. C'était la meilleure chose à faire. Le seul problème était que si elle restait, elle devait remplacer ses comprimés de toute urgence. Elle ne pourrait pas s'en sortir sans eux. Il devait y avoir un médecin en ville qui pourrait lui faire une ordonnance, mais il faudrait qu'elle y aille aujourd'hui. L'argent était une autre préoccupation de taille. Elle doutait que la monnaie qu'Ella lui avait rendue couvre même le coût des médicaments. Alors, comment allait-elle s'y prendre pour payer le médecin? Cassie se rappela que le restaurant lui avait promis un dernier versement de salaire en début du mois pour les horaires irréguliers qu'elle avait effectués en octobre. Elle espérait que ce serait suffisant, car elle ne voulait pas supplier Pierre de lui verser une avance sans pouvoir lui dire pourquoi elle en avait besoin. Quand elle retourna dans sa chambre, elle réalisa qu'elle n'aurait pas besoin de mendier. Ses yeux furent aussitôt attirés par le petit paquet en papier Kraft posé proprement sur son oreiller. Cassie regarda derrière elle et ferma la porte de sa chambre avant de se diriger vers le lit et de le ramasser avec précaution. À l'intérieur du paquet, soigneusement plié, se trouvait une écharpe de soie vert émeraude et deux cents euros en liquide. Elle prit l'écharpe avec un sentiment d'irréalité. Le tissu était fin et doux au toucher, un article coûteux et de qualité. Les billets flambants neufs étaient placés dans une enveloppe blanche. Cassie se sentit mal à l'aise en se rappelant les paroles de Pierre. Je te récompenserai généreusement pour jouer le jeu avec moi. Ce n'était en aucun cas une avance sur salaire, ni un remboursement pour ce qu'elle avait déjà dépensé, ni de l'argent pour l'essence, ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait être considéré comme anodin. Sans aucun doute, Pierre lui avait versé un acompte pour des faveurs qu'il attendait d'elle en retour. Chapitre 16 Bien que Cassie sache que Marny avait sa journée de congé, elle espérait que la gouvernante soit revenue de sa virée à Paris. Après sa rencontre cauchemardesque dans la chambre avec Pierre et le cadeau qu'elle avait trouvé sur son oreiller, elle n'allait prendre aucun risque. Elle ne risquerait pas de passer une autre nuit ici si elle ne pouvait pas fermer sa porte. Elle se rendit dans la cuisine où l'une des servantes lui dit que Marny était revenue juste après le déjeuner. Peux-tu l'appeler pour moi? Demanda Cassie. Je sais qu'elle ne travaille pas aujourd'hui, mais c'est urgent. Quelques minutes plus tard, Marnie entra dans la cuisine. Tout juste revenue de sa sortie, la gouvernante était encore magnifiquement maquillée, les cheveux bouclant sur les épaules, et en comparant son apparence avec celle de la bonne de service, Cassie pouvait voir les différences. Elle comprenait maintenant la règle tacite sur les tenues vestimentaires au château. J'ai besoin d'une clé pour ma chambre, déclara Cassie. Marnie fronça les sourcils. Pourquoi Cette pièce est généralement laissée ouverte. Les enfants ont besoin d'y avoir accès et nous devons pouvoir la nettoyer. En fait, la clé d'origine est perdue et il n'y a qu'un double de disponible. Je me sentirais plus à l'aise si je pouvais la fermer quand j'en ai besoin, dit Cassie. Je suis partie courir tôt ce matin et pendant que j'étais dehors, un des enfants m'a fait une farce en saccageant ma chambre. Oh, ma chère s'exclama Marnie. Mais Cassie devina qu'elle pensait qu'elle réagissait de façon excessive. Je suis sûre que c'était un jeu innocent, expliqua-t-elle, voulant protéger Ella. Mais il m'a fallu toute la journée pour retrouver mon argent et mon passeport. Je ne peux pas risquer que ça se reproduise. Je dois m'assurer que quand je suis dehors et que les enfants sont là, mes affaires personnelles restent où elles sont. Elle sourit avec optimisme. Marnie hocha lentement la tête. Oui, je vois que ça aurait pu être sérieux. Elle avait manifestement réalisé qu'il y avait autre chose derrière cette histoire. Je vais te donner la clé de rechange, mais garde-la en lieu sûr. Ne la laisse pas sur la porte, et s'il te plaît, ne verrouille pas la chambre à moins que tu ne sortes seule. De cette façon, l'horaire de nettoyage ne sera pas perturbé. Cassie se demanda si la clé originale avait disparu après avoir été laissée sur la porte, et si c'était le cas, qui l'avait prise Je la garderai tout le temps avec moi, promit-elle. Merci beaucoup. Elle venait juste de monter quand elle vit Pierre revenir. Prenant son sac à main et sa veste, elle verrouilla la porte de sa chambre, mit la clef dans sa poche et descendit en vitesse pour l'accueillir. Il rentrait plus tard qu'elle ne s'y attendait il était déjà cinq heures moins le quart de l'après-midi. Si elle se dépêchait, elle arriverait peut-être à temps en ville. Bien qu'elle ait pris la décision de rester quelques jours de plus, elle décida de profiter de son voyage en ville pour faire de la reconnaissance elle pourrait obtenir les numéros des compagnies de taxi et aussi vérifier où un réseau téléphonique était disponible. Par la suite, quand elle serait prête à partir, tout se passerait bien avec un peu de chance. Quand Cassie arriva à la porte d'entrée, elle vit que Margot était également de retour. Ses cheveux avaient des nuances plus blondes et avaient été séchés au séchoir. Elle avait dû passer l'après midi chez le coiffeur, et Pierre l'avait récupéré sur le chemin du retour. Margot lui passa devant sans même lui dire bonjour, mais Pierre s'arrêta quand il la vit. « J'ai un service à vous demander, » avança Cassie. « Lequel ?» Pierre déposa ses clés de voiture dans le bol en cuivre sur la table du vestibule. Cassie remarqua que Margot s'était retournée vers eux, voulant manifestement écouter leur conversation. « Pourrais-je prendre une ou deux heures de congé, s'il vous plaît Je dois aller en ville. Maintenant »« Maintenant ?» demanda Pierre en fronçant les sourcils. Ce n'est pas le bon moment. Les enfants doivent dîner dans une heure! observa Margot d'un ton tranchant. Ce voyage ne pouvait pas être repoussé plus longtemps, mais avec Margot à ses côtés, Cassie savait qu'elle allait avoir un refus catégorique. Sans ces médicaments, elle aurait de sérieux ennuis demain à la même heure, mais elle ne voulait pas que Pierre le sache. Il vaudrait bien mieux qu'elle fournisse une autre raison d'y aller. Je dois prendre contact avec l'agence au père et les tenir au courant, expliqua-t-elle. Ils m'ont demandé de le faire au plus tard aujourd'hui. Pierre fronça de nouveau les sourcils. Inutile d'aller en ville pour ça, nous avons un téléphone ici, dit-il. Non, non, protesta Cassie, s'enfonçant dans son mensonge. L'appel est à mon compte, je ne voudrais pas qu'on vous facture pour ça. Je dois aussi faire une course importante. Je. Euh, je dois faire un paiement sur un de mes comptes de vêtements. Le délai est déjà dépassé et la date limite est aujourd'hui. Manifestement, Pierre ne croyait pas à sa piètre histoire improvisée sur le pouce. Ne la laisse pas partir maintenant, ça peut sûrement attendre ce week-end, conseilla Margot. Rejetant en arrière ses cheveux brillants, elle monta à l'étage. J'avais l'intention d'effectuer le paiement avant de quitter les États-Unis, dit Cassie. J'ai manqué de temps pour faire certaines choses à cause de la précipitation pour arriver ici. Pierre serra les lèvres, pensif. Cassie se demanda s'il en concluait qu'elle était à court d'argent et ne pouvait sortir que parce qu'il venait de lui en donner. Quoi qu'il en soit, à son grand soulagement, il acquiesça à contre cœur d'un signe de tête. Faites vite, dit-il, même si vous manquez le dîner, vous devez rentrer à temps pour coucher les enfants. Je serai de retour d'ici là, c'est sûr, promit Cassie. Elle prit les clés de la Renault et courut au garage, se demandant comment elle pourrait trouver un cabinet médical en si peu de temps, si tard dans l'après-midi. Alors qu'elle s'apprêtait à monter dans la voiture, elle entendit des bruits de pas derrière elle. Elle se retourna et découvrit que Pierre l'avait suivi. Cassie le regarda avec appréhension, souhaitant lui jeter son argent à la figure, mais sachant qu'elle ne pouvait pas se le permettre. C'était peut-être pour cela qu'il avait accepté sa sortie, sachant qu'en dépensant l'argent, elle lui serait encore plus redevable. Se mordant la lèvre, elle attendit qu'il parle, se demandant s'il allait encore lui faire des avances, et si oui, comment elle devrait s'y prendre cette fois. Tu vas appeler l'agence? demanda t-il. Oui, oui, je vais les appeler, mentit elle encore. Pierre ajusta la lourde chevalière en or sur son index. Que vas tu leur dire? dit il un ton plus bas. Leur dire? Répéta-t-elle, confuse, avant de réaliser les implications de sa question. Elle se sentit devenir écarlate. Je leur dirai que je suis heureuse ici, que je suis bien installée. Je dirai que mon logement est très confortable, que la nourriture est excellente et que je commence à sympathiser avec les enfants. Elle serra les clés de la voiture dans sa paume, consciente des minutes qui s'écoulaient. À quelle heure les médecins finissaient-ils leur journée en France C'est tout ce que tu vas dire Oui, c'est tout elle se sentit mal à l'aise de répéter ces mots. La vie privée est très importante pour nous, souligna Pierre. La réputation est essentielle pour moi personnellement et pour l'entreprise familiale. J'ai eu des expériences dans le passé où les gens ont menti, exagéré et essayé de faire du mal. Cela a toujours eu des conséquences très graves, pour eux, pas pour moi. Tu comprends ça, Cassie? C'était plus qu'un simple avertissement, c'était une menace. Elle se sentit froide à l'intérieur, se demandant ce qui était arrivé aux personnes qui avaient parlé dans le passé. Je comprends tout à fait, murmura-t-elle. D'une voix plus forte, Pierre poursuivit As-tu assez d'argent pour régler totalement ce compte de vêtements Je vais te donner une avance sur ton salaire pour que tu sois sûr de réussir ta sortie cet après-midi. À son grand étonnement, il sortit un portefeuille en cuir de sa poche ôta quatre autres billets de cinquante euros d'une grosse liasse et les lui remit. Avant qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre ou essayer de les lui rendre, il fit demi tour et quitta le garage. Elle démarra, réalisant que ses mains tremblaient. Le message de Pierre était clair. Coopérer, se taire, jouer le jeu, et tu seras récompensé. Cassie n'osait pas penser quelle serait l'alternative. Inquiète qu'il soit trop tard pour voir un médecin, Cassie oublia de vérifier si elle avait du réseau sur son portable avant d'être presque arrivée en ville. La petite bourgade pittoresque était à quinze minutes en voiture du château, et elle était bien indiquée elle s'y rendit donc sans difficulté une fois sur la route principale. Après avoir parcouru la rue principale et une rue transversale, elle repéra le petit panneau Pharmacie à un angle. Elle se gara et courut à l'intérieur, jetant un coup d'œil aux heures d'ouverture sur la porte, indiquant qu'elle fermait à dix-huit heures. « Où puis-je trouver un médecin J'ai besoin d'une ordonnance de toute urgence », demanda-t-elle au pharmacien, plongé dans une partie de Sudoku sur son téléphone. « Le docteur Lafayette est peut-être encore ouvert. Son cabinet est à son domicile, juste à l'extérieur de la ville. Ce n'est pas loin. Vous avez un GPS ?»« Je ne pense pas pouvoir y accéder sans un signal Wi-Fi », dit Cassie. Alors il esquissa un plan pour elle. Elle parvint chez le médecin juste avant qu'il ne ferme son cabinet et il accepta de la voir. Le cabinet était magnifique, installé dans un bâtiment pittoresque au milieu de jardins somptueux. Le docteur Lafayette lui-même était un homme de grande taille, en forme, d'âge mûr et aux manières sympathiques. Il lui fit visiter ses pièces, décorées de cuir luxueux, avec des tableaux de paysage sur les murs. Vous prenez beaucoup de médicaments, remarqua-t-il surpris lorsqu'elle lui dit pourquoi elle avait besoin de l'ordonnance. Cassie était fort soulagée d'avoir réussi à fournir à la famille Dubois une excuse bidon pour venir en ville, plutôt que de devoir avouer qu'elle prenait un cocktail de médicaments pour l'anxiété chronique. J'ai eu de sérieuses crises de panique dans le passé, dit-elle. Je viens d'arriver dans un nouveau pays qui est plutôt stressant et je ne veux pas que mon anxiété soit déclenchée par le changement d'environnement. Il hocha la tête, griffonnant sur son bloc-note. Vous étudiez ou vous travaillez demanda-t-il. Je suis fille au père, répondit Cassie. Ah Pour quelle famille Elle hésita, se souvenant de l'avertissement de Pierre. Pour la famille Dubois, répondit-elle prudemment, en observant comment le médecin réagissait, mais il regardait ses notes et elle ne pouvait pas lire sur son visage. Savez-vous que. commença-t-il. Elle se crispa déjà tendue, réfléchissant à ce qu'elle dirait s'il lui demandait quoi que ce soit sur Pierre. Mais il ne lui donna que des conseils pour les comprimer. Savez vous que ce médicament provoque de la somnolence? Il vaut mieux prendre ses comprimés le soir. Oui, c'est là que j'essaie de les prendre. En le voyant sourciller, elle corrigea. Je veux dire, c'est là que je les prends, le soir. Et cet autre médicament, là, votre dosage est très élevé, trop élevé à mon avis. Je vais le réduire à un demi comprimé par jour comme dose de maintien. Prenez un comprimé entier si vous êtes anxieuse ou déprimée, mais sinon respectez la dose la plus faible. Une dose plus élevée peut causer des épisodes psychotiques. Je le ferai, promit Cassie. Alors, comment se passe votre expérience de fille au père? demanda t-il en arrachant la page du bloc note. Bien qu'elle ait été formulée de façon neutre, cette question lui sembla importante et Cassie éprouva soudain le vif désir de dire la vérité. Après tout, si elle avait entendu des rumeurs sur la famille de la part d'autres personnes, ce médecin devait aussi en avoir entendu parler. Peut-être l'invitait il à expliquer ce qu'elle traversait, comment son anxiété était montée en flèche, et comment elle était déjà sur le point d'abandonner. Elle pourrait dire au médecin que son employeur avait des tendances sexuelles violentes, qu'il lui avait fait des avances et l'avait ensuite menacée si elle divulguait quoi que ce soit, tout en la soudoyant pour qu'elle se taise. Comment sa compagne avait verbalement agressé les enfants et l'avait agressée physiquement. Elle pourrait expliquer que les enfants risquaient d'être déjà irrémédiablement blessés sans que ce soit de leur faute, et qu'elle était fermement convaincue qu'une intervention professionnelle était nécessaire, ne serait ce que la visite d'une assistante sociale. Il fallait faire vite, car il était déjà six heures moins le quart, et elle devait prendre ses médicaments aujourd'hui mais c'était peut-être la seule occasion pour elle de parler de ses craintes et de ses préoccupations à quelqu'un de confiance. Cassie prit une grande respiration. Je ne sais pas par où commencer, mais je suis soulagée que vous m'ayez demandé ça. Je voulais désespérément parler à quelqu'un parce qu'il y a tant de choses que je dois expliquer, commença t-elle. C'est alors qu'à la réception le téléphone sonna. Excusez moi, dit le docteur Lafayette, ma réceptionniste est déjà partie. Vous permettez que je réponde? Bien sûr, acquiesça Cassie, espérant que l'appel ne serait pas trop long. Le docteur ne fut absent qu'une minute. Merci encore de me recevoir après les heures d'ouverture, dit Cassie à son retour. Je vous suis très reconnaissante. Elle avait l'intention d'en faire un préambule à ses commentaires, mais la réponse du médecin la réduisit au silence. Pierre Dubois est un ami proche. Au fil des ans, il a fait beaucoup pour soutenir mon cabinet, et mon frère est le chef de cave du vignoble de son domaine. Je suis toujours heureux d'aider sa famille ou son personnel. Alors, Cassie, vous alliez me dire comment vous trouvez votre séjour ici? Mais elle était à court de mots, abasourdie par ce qu'il venait de dire. La réponse qu'elle avait formulée si soigneusement se figea sur ses lèvres. Le silence s'étira entre eux, devenant rapidement inconfortable, et elle supposa qu'il avait dû deviner son intention de dire du mal de son employeur et n'avait du coup plus rien à dire. En ce qui concerne la quantité de médicaments que vous prenez, l'avez-vous mentionné à l'agence ou à votre employeur Demanda le docteur. Et non pas demandé, répondit Cassie d'une petite voix. Un autre long silence suivit. Puis le docteur Lafayette se leva et lui remit l'ordonnance. Si c'est tout, nous pouvons passer au règlement, dit-il plus formel. La consultation sera de vingt-quatre euros. Cassie avait espéré pouvoir payer avec sa carte de crédit mais celle ci ne passa pas, et elle ignorait si c'était dû à un manque de provisions sur son compte ou pour toute autre raison. Elle devait donc puiser dans l'argent de Pierre. Maintenant elle lui était vraiment redevable, parce qu'elle ne pourrait pas tout lui rendre. Elle repartit le ventre noué. En toute confiance, elle en avait trop dit au docteur Lafayette, et elle ignorait si sa question au sujet des médicaments était une menace déguisée. Divulguerait il ses détails à Pierre? L'amitié et les partenariats professionnels avaient-ils le dessus sur le secret médical dans cette ville Cassie se rendit compte qu'elle devait dorénavant garder les secrets de la famille pour elle, parce qu'elle n'avait aucune idée de jusqu'où s'étendait son influence ou son pouvoir. Chapitre 17 il était dix huit heures une quand Cassie revint dans la pharmacie, mais le pharmacien l'avait gentiment attendue et il put lui donner une provision d'un mois de tous les comprimés dont elle avait besoin. Cassie était encore chancelante de sa rencontre avec le docteur Lafayette. Elle avait failli lâcher innocemment une bombe qui l'aurait mise dans les pires ennuis. Même sa première allusion aux problèmes qu'elle avait avec la famille pourrait déjà avoir des conséquences. Elle ne pouvait que prier pour que l'amitié personnelle du médecin avec Pierre ne l'emporte pas sur le secret médical, d'autant plus qu'il avait été choqué par la quantité de médicaments qu'elle prenait. Cette ordonnance est renouvelée pour trois mois, lui annonça le pharmacien. Vous pouvez venir à tout moment à partir du 1er décembre pour vos provisions du mois prochain. À son grand soulagement, il put remplacer deux de ses médicaments par des génériques plus abordables, et même si les médicaments coûtaient un peu plus cher que la visite du médecin, sa carte coopéra finalement et elle put s'en servir. Le pharmacien lui permit de se connecter à son Wi-Fi pendant qu'elle attendait, et en consultant son compte bancaire, elle vit qu'un petit paiement avait été effectué par le restaurant. Il avait aussitôt été avalé par le coût de la pharmacie, de sorte qu'elle était de nouveau presque à zéro. Elle fit des recherches sur les taxis locaux et chercha à savoir ce qu'il en coûterait pour changer son vol. Il y avait tellement d'informations contradictoires en ligne qu'elle ne put s'en assurer, mais elle pensa qu'elle pouvait sans doute se le permettre avec le reste de son argent, si elle n'en dépensait pas plus. Cependant, elle dut faire un dernier achat qu'elle put effectuer à la pharmacie. Une recharge importante de minutes de communication prépayée Avec ses minutes chargées et son Wi-Fi opérationnel, Cassie reçut un flot de messages et d'e-mails. Il y avait plusieurs appels manqués de ses amis chez elle et un texto de Jess, la fille au père qu'elle avait rencontrée dans l'avion, lui demandant comment les choses allaient et si elle voulait la retrouver pendant son jour de congé. Cassie n'avait pas assez de temps ni d'argent pour répondre à tous les messages maintenant. Il devrait attendre parce qu'elle avait besoin de conserver ses minutes. Cependant, il y eut un appel urgent qu'elle dut passer immédiatement. Elle retourna à la voiture et composa le numéro dès qu'elle monta à l'intérieur, faisant un calcul mental pour déterminer quel était le décalage horaire chez elle. C'était le début d'après midi, ce qui signifiait qu'en semaine, Zane serait en poste à l'usine où il travaillait. Néanmoins, il répondit à son appel au bout de trois sonneries. Attends, bébé, je pointe juste pour faire une pause, dit il, et elle dut patienter quelques minutes interminables et coûteuses en l'écoutant quitter l'usine. Elle l'imaginait vêtue de son jean et de sa veste de travail, marchant sur le dallage en béton vers l'entrée latérale où se trouvait l'espace fumeur. Les ferraillements en fond sonore firent place au souffle du vent, indiquant qu'il était sorti. Ok, dit il, j'ai dix minutes. Parlons. Cassie espérait que la conversation ne durerait pas dix minutes. Elle voulait résoudre ce problème le plus rapidement possible, sans trop perdre ses précieuses minutes. Zane, comment tu as su où j'étais Je ne t'ai pas donné le numéro de téléphone de mon employeur. Je ne l'ai donné à personne. Il m'a fallu faire un travail de détective, expliqua-t-il d'un ton autosatisfait. Tu vois, j'ai remarqué le nom de cette agence sur ton sac, alors je l'ai appelé et j'ai fait semblant d'avoir perdu ton numéro. La première fois que j'ai essayé, j'ai eu une dame qui ne voulait pas me le dire. Elle ne pouvait que te faire passer un message. Mais la deuxième fois, un autre type a répondu, et il a cherché pour moi. N'appelle plus là bas, s'il te plaît. Pourquoi pas, bébé? Tu ne veux plus du tout me parler? C'est pas ça. Comment pourrait elle expliquer sans rendre Zane encore plus déterminée à continuer d'appeler le château? Elle ne voulait pas qu'il pense qu'il devait venir à sa rescousse. C'est une famille très privée dit-elle. « Ils ne permettent pas au personnel de recevoir des appels privés dans la maison. Normalement, ils ne transmettent même pas de messages. Tu as eu de la chance que ce soit la gouvernante qui réponde. Pourvu que ça convainque Zane que c'était inutile d'essayer de nouveau. Alors quand est-ce que tu rentres à la maison ?» Il avait l'air découragé mais pas vaincu par ce qu'elle venait de dire. Cassie vérifia l'horloge de la voiture. Il était déjà six heures et demie. Elle devait se dépêcher de rentrer, mais ne pouvait pas partir avant d'avoir réglé ce problème, car elle ignorait combien de temps le signal durerait. Je vais rester à l'étranger pendant au moins un an, lui dit elle. Elle l'entendit s'exclamer d'indignation. Penses tu vraiment que c'était juste à mon égard que tu partais si longtemps sans au moins me dire au revoir correctement? Zane, on avait rompu avant mon départ. Exaspérée, Cassie réalisa que la conversation tournait en rond. Elle démarra la voiture et augmenta le chauffage, espérant pouvoir retrouver le chemin du château dans l'obscurité. « Non, tu m'as quitté. On n'a jamais rompu. Je suis revenue un jour et j'ai découvert que tu avais fait tes valises et que tu étais partie. Il y avait une raison à cela, et tu sais laquelle. » Cassie pouvait entendre le tranchant dans sa propre voix. Elle ne lui avait pas pardonné ce qu'il avait fait. « Je n'en ai aucune idée, bébé, et je le pense vraiment. Aucune idée du tout. » Il mentait forcément. Zane, tu t'es fâché contre moi quand on s'est disputé. Tu as perdu ton sang froid et tu m'as empoigné si fort que tu m'as presque arraché du sol. Puis tu m'as frappé au bras. Les bleus ont mis des semaines à disparaître. Tu voulais me faire mal. Comme je te l'ai dit à l'époque, je ne supporte pas ça et je ne suis pas prête à te donner une seconde chance. Il y eut un court silence. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Tu veux dire quand je t'ai écarté de la trajectoire de cette voiture, bébé, on se disputait dans un parking et tu étais contrarié, tu ne regardais pas, tu allais littéralement foncer droit dans ce SUV. J'ai juste voulu te protéger. Ça ne s'était pas passé comme ça, pas du tout. Sa version était à mille lieues de la vérité. L'écouter rendait Cassie encore plus déterminée à rester loin de lui pour toujours. Elle savait que si elle avait été là, à voir comment il haussait les sourcils et tendait les bras innocemment pendant qu'il parlait, L'air comiquement sans défense, elle aurait voulu croire à son histoire. Une partie d'elle aurait voulu croire qu'il avait raison et qu'elle avait mal interprété la situation. Je ne me battrai plus avec toi, Zane, mais je ne reviendrai plus. Je t'en prie, Cassie, tu ne comprends pas à quel point tu me manques. Tous nos amis demandent où tu es. Oh, et je voulais te dire qu'il y a un poste vacant à l'usine. Pas dans les ateliers, dans les bureaux. Ils cherchent un assistant pour l'équipe marketing. C'est un bon salaire avec de très bons débouchés. J'ai dit que je t'en parlerai. Tu veux que je t'envoie les détails Les candidatures doivent être reçues avant lundi. Cassie tenta d'être sourde à ces paroles. Zeyn avait le don de deviner exactement ce qu'il lui faudrait pour changer d'avis, et à l'heure actuelle, elle devait admettre qu'un emploi avec des débouchés serait une vraie planche de salut. Elle se dit que ce poste en marketing n'existait même pas, et que même s'il existait, les candidatures étaient probablement déjà closes, et même si le poste était encore vacant, pourquoi le lui donnerait il? Ce n'était pas comme si Zane, un simple ouvrier, pouvait faire quoi que ce soit pour influencer la décision. Pas maintenant, merci. Je m'engage à rester ici, donc je ne peux pas rentrer à la maison. Mais bébé, tu n'as pas l'air heureuse. Je l'entends dans ta voix. Tu as l'air stressée, tu ne peux pas rester là bas si ce n'est pas bon pour toi. Cassie grinça des dents. Je suis stressée parce que je suis en retard. Je dois y aller maintenant. Je t'en prie, ne me rappelle pas. Je ne répondrai pas et ne te parlerai pas. Au revoir, Zane. Elle tapa sur le bouton de déconnexion, mettant fin à ses cris de protestation. Puis elle éteignit son téléphone et sortit du parking, frustrée par cette conversation inutile et par sa propre faiblesse. Pourquoi était-ce si difficile pour elle de lui tenir tête? Même quand elle avait enfin trouvé la force de lui raccrocher au nez, elle avait dit Je t'en prie, ne m'appelle plus. Je t'en prie, comme si elle lui demandait une faveur. Elle n'arrêtait pas de mettre tout le pouvoir entre ses mains. Pas étonnant qu'il croyait pouvoir avoir une autre chance avec elle. En tout cas, à cause de cette conversation, elle allait rentrer encore plus tard. Elle n'arriverait peut-être même pas à temps pour mettre elle là au lit, et elle devrait expliquer pourquoi elle avait passé tant de temps en ville. Alors qu'elle se creusait la tête pour trouver une excuse valable, elle rata l'embranchement vers le château. Tout semblait si différent dans l'obscurité. Bien que le chemin de la ville ait été bien balisé, elle n'avait pas pensé à repérer une signalisation dans l'autre sens. Maintenant elle réalisait son erreur. La ville était clairement indiquée, mais pas le château. Elle était désorientée et n'avait aucune idée de la direction à prendre. Elle s'arrêta pour essayer de se connecter au GPS, mais à son grand désespoir, elle ne put obtenir de signal. Quelques kilomètres plus tard, elle se rendit compte qu'elle était allée trop loin et tenta de faire demi tour, mais au lieu de tourner à droite pour contourner le pâté de maison, elle prit par erreur une bretelle d'autoroute. Elle se retrouva sur l'autoroute en direction de Strasbourg. Merde, 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 chuchota t-elle, réalisant l'ampleur de l'erreur qu'elle avait faite. Sur cette autoroute qui ressemblait à un circuit, elle ne pouvait pas rouler lentement pour prendre ses repères. La circulation filait vite, et il fallait accélérer pour éviter de causer un accident. Tenant fermement le volant, Cassie se rendit compte qu'elle pourrait être forcée de rouler sur des kilomètres le long de cette route infernale, aussi claire et lumineuse que les routes de campagne avaient été sombres, mais elle filait à toute vitesse dans la mauvaise direction. Retrouverait-elle le château? Et, si oui, comment expliquerait-elle son retard impardonnable, après qu'on lui ait expressément dit de revenir à temps pour mettre les enfants au lit? Après ce qui sembla être un trajet sans fin, Cassie réussit à trouver une sortie où elle put faire demi-tour et revenir en arrière, mais après l'erreur qu'elle avait commise et le stress du trajet, elle perdit tout sens de l'orientation. Elle rata la bretelle de sortie dans l'autre sens et dut recommencer tout le processus, cette fois en direction de Paris. Quand elle réussit enfin à prendre ce qu'elle croyait être la bonne sortie, elle ne se souvenait d'aucun des tournants qu'elle avait pris pour atteindre l'autoroute, et avec un sentiment de malédiction, elle se rendit compte qu'elle s'était complètement trompée. Cassie avait l'impression d'être coincée dans un cauchemar sans fin, dévalant chacune des routes de campagne sombres et tranquilles qu'elle empruntait, scrutant désespérément l'obscurité, espérant trouver une sorte de repère qui pourrait lui servir à s'orienter mais les minutes s'écoulaient et aucun repère n'apparaissait. Les maisons dans ce secteur étaient bien en retrait de la route, et seulement quelques unes avaient des sonnettes ou des interphones au portail. En désespoir de cause, elle essaya de sonner à quelques unes de celles qui en avaient, mais deux ne reçurent aucune réponse une personne lui conseilla une direction qui la ramenait à l'autoroute, et la dernière, une vieille femme, admit finalement, après un échange incroyablement frustrant, qu'elle ignorait où était le château. Enfin, par pure chance, Cassie tomba sur une route qu'elle crut reconnaître. Elle n'en crut pas ses yeux lorsqu'elle se rendit compte qu'elle approchait du château par une tout autre direction, en passant par le petit village où la fête foraine avait eu lieu. Entre temps, elle avait perdu tout espoir, car il était trop tard pour se racheter ou même pour s'expliquer correctement comment une personne normale peut elle se perdre aussi royalement, aussi incroyablement qu'elle l'avait fait? Elle avait arrêté de regarder l'horloge de la voiture pendant qu'elle cherchait, car cela ne faisait qu'aggraver sa panique, mais maintenant Cassie y jeta un coup d'œil pendant qu'elle roulait dans l'allée sinueuse. Il était presque vingt heures, et elle se préparait à une rafale de critiques de la part de Pierre. Il exigerait de savoir où elle était allée, et elle ne savait pas comment elle allait le convaincre qu'elle conduisait dans le coin depuis plus d'une heure. Quand elle ouvrit la porte, elle n'était pas préparée au chaos qu'elle trouva à l'intérieur. Une assiette décorative gisait en mille morceaux près de l'escalier, et quelqu'un, Marc, supposa t-elle, frappait au hasard les touches du piano dans la salle de musique. Ella était assise en pleurs en haut de l'escalier, et plus loin, elle entendait Margot et Antoinette se crier dessus dans la salle à manger. Désolée d'être si en retard. Est-ce que tout va bien demanda Cassie, prise d'angoisse. Où était Pierre Que s'était-il passé Elle doutait que les enfants perdraient tout contrôle comme ça s'il était à la maison. Un bref silence suivit son appel. Puis Margot hurla à son tour d'une voix perçante, véhémente et furieuse Viens ici immédiatement, Cassie Comment oses tu me laisser seule avec les enfants toute la nuit? Où diable étais tu passé? Margot n'attendit pas que Cassie atteigne la salle à manger. Elle l'affronta dans le couloir, rouge de colère, ses beaux cheveux blonds tout ébouriffés. Tu m'expliques tout tout de suite. Cria t-elle. Cassie sentit l'alcool dans son haleine, quelque chose de plus fort que du vin. Elle empestait l'alcool fort. Et tu ferais mieux de dire la vérité cette fois, sale putain de menteuse. Chapitre 18 Cassie dévisageait Margot, choquée. Elle était horrifiée que la blonde crie ses insultes à portée de voix des enfants, et elle ne savait pas du tout comment désamorcer la situation qui était déjà devenue explosive. Margot avait manifestement beaucoup bu, et Cassie devina qu'elle n'avait pas réussi à gérer seule les enfants et qu'elle avait rapidement perdu le contrôle. Maintenant, elle déversait sa rage sur Cassie parce qu'elle était sortie et l'avait laissée dans cette situation difficile. C'est peut-être en partie pour cela qu'elle était si en colère, parce qu'elle se sentait impuissante. Je suis désolée d'être rentrée si tard, dit elle, faisant de son mieux pour parler calmement. J'ai pris un mauvais chemin en revenant de la ville, et je me suis complètement perdue. Devrais je mettre les enfants au lit maintenant? Oh. Tu t'es trompée de chemin. C'est pour ça que tu es en retard. Persifla Margot. Elle s'avança, se penchant si près de Cassie que celle-ci put distinguer la broderie délicate sur son onéreux manteau turquoise. Tu ne veux pas que les enfants sachent que leur fille au père n'est rien de mieux qu'une vulgaire salope de menteuse Cassie recula en réalisant que Margot ne se contentait pas de lancer des insultes au hasard, mais qu'elle avait tiré une conclusion tout à fait erronée. Ou peut-être, se dit elle avec une pointe de culpabilité, se souvenant des menaces et promesses murmurées par Pierre dans sa chambre auparavant, pas aussi erronées que Cassie l'aurait souhaité. Regardant derrière Margot, Cassie aperçut Antoinette qui les observait à la porte de la salle à manger. Pour une fois, l'assurance habituelle d'Antoinette l'avait abandonnée. Son visage était pâle et figé, et Cassie devina qu'elle avait pleuré. S'il vous plaît, peut on en parler en privé? supplia t-elle à Margot. Vous n'avez pas du tout compris la situation. Je vais tout vous expliquer, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée que les enfants entendent ça. Margot ignora ses supplications et reprit sa tirade furieuse. Tu pars, Pierre part tout de suite après, et tu reviens plus de trois heures plus tard? Il n'est toujours pas revenu. Tu penses que je suis stupide? Tu sais ce que tu as fait? J'ai vu la façon dont il te regarde. J'ignore où Pierre est allé, insista Cassie, consciente de la faiblesse de sa réponse et de la coïncidence qu'il soit parti juste après elle, sans même avoir prévenu qu'il allait sortir. Montre moi ton portefeuille. Allez, sors le de ton sac et montre moi. Margot pointa un doigt à l'ongle pourpre sur le sac à main de Cassie. Mon portefeuille? Qu'espérait trouver Margot? Une carte clé d'hôtel? Un mot écrit à la main? Elle ne possédait rien de tel. Confuse, elle ouvrit son sac à main et le lui tendit, espérant qu'il prouverait son innocence, craignant trop tard que Margot ne déchire tout son portefeuille dans sa colère. Margot le lui arracha des mains et l'ouvrit. Tu vois lança-t-elle triomphalement, tirant une liasse de billets orange de cinquante euros et les jetant à terre. Cassie regarda les billets flotter vers le sol, et son estomac tomba avec eux, parce qu'elle réalisa que l'instinct de Margot était juste. Quelle somme d'argent pour quelqu'un qui se plaignait ce matin que tout son argent avait été volé. Ironisa Margot. Tu vas prétendre que tu as retiré tout ça de ton compte en banque en ville? Je croyais que tu allais payer une facture, pas être payé. Mais quelqu'un t'a donné de l'argent, n'est ce pas? Je me demande bien qui ça peut être. Pierre m'a donné une avance sur mon salaire, dit Cassie. Oh. Non, il ne l'a pas fait. Tu lui as soutiré l'argent d'une autre façon, sale pute. Cassie étouffa un cri quand Margot lui saisit l'épaule, la poussant en arrière. Elle trébucha et son sac glissa de son épaule. Le contenu se répandit par terre. Baume et rouge à lèvres, pince à cheveux, stylo éparpillé sur le carrelage en marbre. Elle baissa les yeux. Margot lui asséna une claque cinglante. Cette fois, Cassie cria. Son premier réflexe fut de gifler la blonde en retour. La force de sa propre colère l'effrayait. Elle se maîtrisa avec beaucoup de peine, se disant qu'elle devait être la meilleure et la plus forte ici, ne pas s'abaisser au niveau de Margot. Elle devait tâcher de résoudre ce problème pacifiquement, surtout en voyant qu'Antoinette regardait la scène. Je vous en prie, Margot, calmez vous. Ce que j'ai dit est la vérité. Margot la poussa de nouveau, et Cassie marcha sur son rouge à lèvres, faillit tomber alors qu'il roulait sous son pied. Elle entendit un craquement quand le tube se brisa elle commençait à se sentir étrangement dissociée. La façon dont Margot se penchait sur elle, les railleries, la puanteur de l'alcool dans son haleine, tout cela était en train de déterrer des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis longtemps. D'autres endroits, d'autres époques, quand elle était beaucoup plus jeune, morte de peur, et qu'elle affrontait une autre femme ivre et en colère qui la narguait. Hélène, celle qu'elle détestait le plus de toutes les petites amies de son père. Cassie se rappela maintenant qu'elle n'avait pas seulement souhaité son départ, elle avait vraiment souhaité sa mort. Et elle l'avait dit, l'avait crié en frappant la femme à coups de poing et de pied, en pliant les doigts pour essayer de lui arracher les yeux. J'aimerais que tu sois morte. Avait elle hurlé à Hélène. Prends ta voiture et plante toi avec. Monte à l'étage et saute par la fenêtre. Et Hélène avait crié en retour, l'attaquant avec beaucoup plus de force. Dégage, espèce de salope maigrichonne et stupide. Va te jeter sous un camion, ou trouve l'arme de ton père et joue avec. Tu crois qu'on veut de toi ici? Ces paroles avaient creusé un gouffre géant dans le cœur de Cassie, parce qu'elle savait au fond d'elle-même qu'en vérité, personne ne voulait d'elle là-bas. Ni son père, ni Hélène, ni aucun de leurs amis ivrognes. Elle était une dépense, une responsabilité, un inconvénient. Et peut-être, rien qu'en la regardant, son père se souvenait trop bien de sa mère et de celui qu'il était avant. Maintenant, alors qu'elle luttait pour garder son contrôle, elle se rappela comment elle l'avait perdue cette fois-là. Hélène et elle s'étaient fait mal. Hélène lui avait arraché une mèche de cheveux, faisant saigner son cuir chevelu, et Cassie avait disloqué le doigt d'Hélène, de sorte qu'elle avait hurlé de souffrance et l'avait finalement laissé partir. Hélène avait dû se rendre aux urgences pour se faire soigner. Et elles avaient fini par appeler une ambulance, parce que lorsque son père était revenu une demi-heure plus tard, il était déjà trop saoul pour l'y conduire. En Margot, désormais, elle vit la même colère, la même perte de contrôle, la même haine. La blonde grogna de rage en empoignant Cassie. Ses ongles lui griffaient la peau, déchiraient ses vêtements, ses phalanges la frappaient au visage. Arrêtez cria Cassie. Elle laissa tomber son sac à main et abandonna son propre conseil. Elle n'était pas prête à tolérer cet abus une seconde de plus. Elle avait donné à Margot plus qu'assez de temps pour se calmer et reprendre ses esprits, et elle ne l'avait pas fait. Elle était au-delà de la raison ou des mots, elle était à l'attaque, et Cassie était prête. Alors que Margot plongeait sur elle, elle s'agrippa au visage de la blonde, sentait ses ongles lui râper la peau et l'entendit haleter. Mais l'un de ses talons aiguilles vert citron se planta dans le pied de Cassie, poignardant la fine toile de sa basquette. Elle tituba en arrière, hurlant de douleur, mais ayant le pied coincé, elle perdit l'équilibre et tomba, sa hanche et son épaule heurtant le glissant carrelage de marbre. Elle entendit un cri de terreur derrière elle et sut qu'Ella était venue voir ce qui se passait. Ella, remonte là-haut cria-t-elle. Elle ne pouvait rien faire si Ella ignorait son ordre. Les enfants seraient affectés par cette situation et le seul choix qui s'offrait à elle était de savoir s'il la verrait vaincue par Margot ou s'il la verraient gagnée. Cassie se défendit de toutes ses forces. Elle s'agrippa aux chevilles de Margot, espérant la déséquilibrer. Mais Margot se mit à piétiner et balancer des coups de pied, de sorte que Cassie dut s'écarter pour éviter ses talons mortifères. Elle riposta d'un coup de pied et frappa le tibia de Margot qui glapit de douleur. Encouragée, Cassie la frappa de nouveau et Margot recula, jurant férocement. Puis, Cassie vit derrière Margot qu'Antoinette était entrée dans la mêlée. Les yeux plissés, elle visa soigneusement, avant de cogner de toutes ses forces la blonde à l'arrière du genou. La jambe de Margot fléchit et, en criant, elle s'effondra sur ses talons. Elle se cramponna à une étagère pour ralentir sa chute, et en arracha un côté de ses charnières. Des oiseaux de cuivre dégringolèrent autour d'elle, mais Margot rattrapa un grand masque africain avant qu'il ne tombe. Salope. Tu m'as fait mal. Utilisant le lourd masque comme une bête, elle le balança sur Cassie, qui esquiva. La tête en bois s'écrasa par terre, juste là où avait été son bras. Margot étant déséquilibrée, elle saisit l'autre extrémité du masque, essayant de l'arracher de ses mains. Margot se pencha vers elle, hurlant menaces et obscénités, en tentant de la repousser. Salope. Pute. En la repoussant d'une main et en tenant le masque d'une poigne de fer, Cassie parvint à se relever. Puis elle repoussa aussi fort qu'elle put le masque sur Margot jusqu'à ce que celle ci s'affale par terre. Cassie jeta le masque sur elle, ressentant un frisson de triomphe quand il se fracassa sur son front. Puis elle fit volte face et courut. C'en était trop. Elle allait s'enfermer dans sa chambre jusqu'à ce que Margot ait retrouvé la raison. Heureusement, Ella n'était pas à portée de vue, et Cassie espérait qu'elle était partie quand elle le lui avait ordonné, n'était pas restée pour regarder toute la lutte. En tournant à l'angle du couloir, Cassie se heurta à Pierre. Elle le vit à la dernière seconde, et même en tentant de ralentir, elle le heurta avec une certaine force. Pierre l'empoigna fermement, tandis qu'ils titubaient tous deux en arrière. Qu'est ce qui se passe ici? cria t-il. Margot tourna à l'angle, et Cassie, qui se débattait dans les bras de Pierre, vit le venin sur ses traits. Ne la touche pas cracha Margot. Sa joue saignait, les ongles griffus de Cassie avaient entaillé sa peau de porcelaine, et elle boitait, mais elle ignorait les deux blessures, plus furieuses que jamais. Qu'est-ce que tu insinues demanda Pierre. Sa voix était plus calme, mais son ton mit Cassie très mal à l'aise. Elle et toi Margot pointa un doigt sur chacun d'eux pour souligner ses paroles. Vous étiez ensemble. N'essaie pas de le nier. Je sais ce que tu faisais. Pierre émit un gros soupir. Margot, tu as tort. Je suis allé à Paris pour évaluer une sculpture qui sera mise aux enchères la semaine prochaine. Ton comportement est complètement déplacé, tout comme le tien. Il se tourna vers Cassie, ses épais sourcils froncés. Avant que Cassie n'ait eu le temps d'expliquer qu'elle avait agi en légitime défense contre la folle que Margot était devenue, il poursuivit. Va dans ta chambre immédiatement, Cassie, je ne te demande plus de travailler ce soir. Je vais m'occuper des enfants maintenant. Nous discuterons de cette situation demain. Mais, tenta t-elle. Va, insista Pierre. Malgré sa voix tonitruante et son ton définitif, Cassie eut le courage de tenir tête. Elle ne pouvait pas se permettre de partir sans expliquer ce qui s'était passé. S'il vous plaît, voulez vous bien m'écouter? Ce n'est pas de ma faute, insista t-elle. Si ça l'est. Siffla Margot derrière elle. Margot m'a attaqué, je n'ai fait que me défendre. C'est faux Regarde comme mon visage est griffé protesta Margot. Pierre les regarda tour à tour. Avec une bouffée d'espoir, Cassie crut qu'il accepterait au moins ce qu'elle avait dit. Mais son visage s'assombrit. Margot est ma fiancée et je vais d'abord écouter sa version de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je crois que tu es revenu avec un retard inacceptable. Si tu avais été à l'heure, rien de tout ça ne serait arrivé. Nous en reparlerons demain. Frustrée que Pierre refuse de l'entendre, mais sachant qu'elle ne pouvait pas pousser la situation plus loin, Cassie se retira. Elle ramassa ses affaires éparpillées et les remit dans son sac. L'un des billets était déchiré, et le rouge à lèvres écrasé était irréparable. En s'éloignant, elle eut honte, comme si les paroles dédaigneuses de Pierre avaient déjà décidé de sa culpabilité. Le piano s'était arrêté. Cassie supposa que Pierre avait fait un détour par la salle de musique en passant, parce que Marc n'était pas visible. Alors qu'elle atteignait l'escalier, Marnie se précipita hors de la cuisine avec une pelle à poussière et une balayette pour ramasser les fragments de l'assiette. Je crois comprendre que tu viens juste d'avoir une horrible dispute avec Margot, chuchota-t-elle. Cassie acquiesça. Je te parlerai plus tard, dit Marnie. Avant de se retourner et de se pencher pour balayer le désordre sur le sol, Ella était toujours en haut de l'escalier, pleurant à chaudes larmes. Tu vas me mettre au lit maintenant sanglota-t-elle. Margot a été si méchante avec nous ce soir. C'est ton père qui va te mettre au lit, dit Cassie. Peut-être qu'il te lira une histoire si tu lui demandes gentiment. Elle ébouriffa les cheveux d'Ella en passant. Après avoir essayé à trois reprises d'insérer sa clef dans la serrure, elle se rendit compte à quel point elle s'était mise à trembler. Quand elle entra dans sa chambre, elle était au bord des larmes. Elle était profondément traumatisée par la bagarre et furieuse des accusations de Margot. Elle aurait souhaité jeter ce masque assez fort pour l'assommer non, assez fort pour causer des dégâts permanents à son cerveau égoïste et cruel. Les scènes de la lutte tournaient en boucle dans sa tête, la puanteur d'alcool de l'haleine de Margot et les insultes qu'elle avait lancées à Cassie. Comment elle avait dû s'écarter de ce talon pointu vers citron pendant que Margot tentait de la piétiner. La façon dont sa vision avait explosé en étoile quand elle avait heurté le sol. Le visage hagard d'Antoinette, comme si elle en avait eu assez des manières brutales de Margot. Le soupçon de parfum qu'elle avait senti de façon impromptue, un parfum délicat et féminin qui l'avait choqué pour une raison inexpliquée. Cassie fronça les sourcils, essayant de le situer. Elle ne l'avait pas remarqué quand Margot l'avait attaquée. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle réalisa d'où il provenait. C'était justement après s'être connu à Pierre. Elle l'avait senti s'attarder sur sa peau. Cassie se demanda tout à coup si Pierre n'avait pas effectivement eu un rendez vous romantique avec une autre. Eh bien, que ce soit le cas ou non, l'attaque de Margot était complètement injustifiée, et Pierre avait fait la sourde oreille quant à sa version de l'histoire. Il s'en fichait, il ne l'avait pas défendue et ne ferait rien pour empêcher que cela se reproduise. Quant à Margot, c'était un diable sorti tout droit de l'enfer. Cassie bouillit de rage en pensant à la façon dont elle avait été traitée. C'était totalement inadmissible. Ce ménage était coincé dans l'âge des ténèbres de bien des façons. Il n'y avait pas de réseau cellulaire, pas d'internet, pas de télévision, et la fiancée du propriétaire se sentait le droit d'abuser du personnel comme si c'était ses biens, même pas des êtres humains. Plus elle y songeait, plus la colère montait en elle devant ce traitement injuste. Elle avait envie de se ruer dans la chambre de Pierre et de gifler Margot de toutes ses forces. Ça lui apprendrait. Un léger tapotement sur la porte de sa chambre éloigna Cassie de ses idées vengeresses. Entrez, invita t-elle. Marnie entra, ferma vite la porte derrière elle. Elle tenait une assiette couverte. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé, chuchota-t-elle en posant l'assiette sur le bureau. Je ne sais pas si tu as mangé ce soir, mais je t'ai apporté du fromage et des biscuits au cas où tu aurais faim. Merci, dit Cassie. Elle n'avait pas du tout faim, mais le geste de Marnie était si gentil qu'elle ne pouvait pas refuser la nourriture. Elle découvrit l'assiette et prit un biscuit mais sa bouche était si sèche qu'elle avait du mal à le mâcher. Elle toussa et prit un verre d'eau sur sa table de chevet. Je suis désolée de ce qui s'est passé, répéta Marny. Les choses sont très difficiles pour nous tous depuis l'arrivée de Margot. J'imagine bien. La fois où je lui ai dit qu'une livraison de nourriture serait en retard et qu'il faudrait changer le menu prévu pour dîner, elle m'a giflé. Vraiment? Toi aussi? C'est horrible. Qu'est ce que tu as fait? Les traits de Marnie se durcirent. J'étais tellement surprise à l'époque que je n'ai rien fait. Ensuite j'ai été si furieuse que j'aurais pu la tuer. Je n'ai jamais, jamais eu un employeur qui me traite de cette façon. Mais je ne me suis pas plainte parce qu'elle a viré trois membres du personnel de maison après qu'un bijou ait disparu. Je ne pense pas qu'il ait disparu du tout. Je crois qu'elle l'a vendu et Pierre a remarqué qu'il n'était plus là. Vraiment? Oh. Oui. Pierre contrôle l'argent et ce qu'elle dépense. S'ils se disputent, les vivres sont coupés. Du moins, c'est ce que j'ai compris d'après les querelles bruyantes que j'ai captées. Que penses-tu de cette situation demanda Cassie en grignotant un morceau de fromage. La conversation était bizarrement réconfortante. Au moins, elle n'avait plus l'impression d'être la seule ennemie de Margot. Tous ceux qui travaillent ici la détestent, et aucun de nous ne veut rester. Je cherche un autre emploi, avoua Marnie. J'ai déjà une offre d'une maison d'hôte dans un village voisin. À la fin du mois, je déciderai où aller, et je donnerai ma démission. Je ne vais pas te le reprocher. Je ressens la même chose, et je ne suis ici que depuis trois jours. Je veux aussi partir, et je pense que je vais le faire. Marny hocha la tête en signe de compassion. Ce n'est pas facile ici. Personne ne peut en vouloir de vouloir partir. La fille au père qui travaillait ici avant toi est partie après un mois pour les mêmes raisons. Et maintenant, je ferai mieux de te laisser dormir un peu. Oublions que nous avons eu cette conversation et n'en parlons plus, ou ça ne se passera pas bien pour nous deux dans cette maison. Elle adressa un sourire complice à Cassie en partant. Cassie estima que les paroles de Marnie avaient cimenté sa propre décision. Elle n'était pas prête à rester dans un foyer où un tel niveau de violence pouvait et allait se produire régulièrement. Elle était déjà une épave émotionnelle et physique, et elle venait de découvrir que sa seule amie allait partir à la fin du mois. Cassie décida que pour sa propre santé mentale, elle devrait partir au petit matin. Elle consacra une heure à faire soigneusement ses valises. Elle se fichait des implorations d'Ella ou des menaces de Pierre. Elle n'allait pas penser aux implications professionnelles de cette décision. Elle allait prendre soin d'elle même et de son propre bien-être, et elle ne pouvait qu'espérer que le reste se mette en place. Quand tout fut remballé et prêt au départ, Cassie se coucha, mais ne put trouver le sommeil. Son dos était meurtri et douloureux, elle s'était froissé un muscle de l'épaule pendant la bagarre avec Margot, et ce n'était là que les blessures physiques. Depuis qu'elle avait quitté la maison familiale, elle avait fait des pieds et des mains pour éviter de répéter ce qu'elle avait enduré dans son enfance. Elle avait fui activement les conflits. Elle avait rompu avec Zane dès qu'il avait levé la main sur elle par excès de colère. Elle avait choisi des amis qui étaient gentils et vivaient de la manière à laquelle elle aspirait. Et elle avait essayé de choisir des emplois où elle aurait le moins de friction possible sur son lieu de travail. Maintenant, elle avait l'impression qu'une boîte de Pandore de souvenirs avait été ouverte. Elle se souvenait des fois où son père l'avait frappée. Cela avait commencé par des bousculades et des gifles occasionnelles, puis s'était transformé en véritable raclée, comme s'il ne pouvait pas contrôler sa rage intérieure face au tournant désolant que sa vie avait pris, et du coup se défoulait sur elle. Cassie se rappelait à présent qu'il y avait eu d'autres bagarres avec Hélène, et elle se souvenait avec acuité de la fois où elle avait surpris un ami d'Hélène dans sa chambre, fouillant dans ses tiroirs. Sa seule arme était les clefs de la maison qu'elle tenait. Elle avait attaqué le petit homme d'âge moyen avec, et il avait fini par sortir de la pièce en courant avec une coupure sur le visage. Mais il était revenu plus tard dans la nuit. Eh. Ma petite chérie, tu es la fillette. Cassie frissonna. Elle se souvenait de la panique étouffante qu'elle avait ressentie en se cachant de lui, sachant que s'il la trouvait là, il ne chercherait pas seulement à se venger de la blessure qu'elle lui avait causée, mais à faire quelque chose de pire. Les mains tremblantes, elle ouvrit les boîtes de comprimés qu'elle avait prises à la pharmacie. Ce n'était pas le moment de prendre des demi doses. Elle en prit une de chaque. Il lui restait juste assez d'eau dans son verre pour les avaler. Puis elle se blottit sur ses oreillers, endolorie et traumatisée, attendant que les comprimés agissent pour pouvoir enfin s'endormir. Cassie sortit du lit sur la pointe des pieds, s'approcha de la porte aussi silencieusement que possible. Elle écouta attentivement, attendant une accalmie des rafales de vent qui secouaient sa fenêtre. Puis elle l'entendit sans ambiguïté, le son doux et continu d'une respiration. Quelqu'un se tenait devant sa chambre. Chapitre 19. La main de Cassie tremblait lorsqu'elle tourna la clé dans la serrure. Elle tenta de le faire discrètement, mais il y eut un déclic audible, puis la clé se bloqua. Elle entendit des pas s'éloigner rapidement. Cassie batailla avec la serrure et finalement la clé tourna. Elle ouvrit la porte et scruta le couloir. Personne n'en vue. Qui était venu devant sa chambre Pierre Margot une juste colère menaçait pas dans le couloir de la chambre de Pierre. Dès qu'elle tourna à l'angle, elle entendit des voix s'élever et se rendit compte qu'ils se disputaient derrière la porte close. Donc ça ne pouvait être ni l'un ni l'autre. C'était une discussion houleuse et acrimonieuse, et Cassie se demanda si Margot aussi avait senti le parfum sur la peau de Pierre, ou s'ils se disputaient encore sur la façon dont elle s'était comportée avec Cassie. Elle était curieuse de le savoir, mais les paroles n'étaient pas clairement audibles de l'autre côté de la porte. Elle se sentit nerveuse à l'idée de s'approcher à nouveau de cette chambre. Elle y était allée deux fois, et les deux fois, ça s'était mal terminé. Elle ne voulait pas prendre le risque d'être découverte une troisième fois, bien qu'au fond d'elle même, elle fantasmait de défoncer la porte, d'interrompre leur dispute, et d'exiger qu'ils entendent sa version. Au moins, elle aurait eu son mot à dire avant de partir tandis qu'elle se tenait indécise dans le couloir, les voix cessèrent brusquement. Cassie se dépêcha de retourner dans sa chambre. Elle éteignit sa lampe et, pour se calmer, prit un autre comprimé dans la plaquette et l'avala sans la moindre goutte d'eau. Si la somnolence était un effet secondaire, elle était heureuse de prendre le double de la dose recommandée. C'était le seul moyen de s'endormir après le traumatisme de la journée. Au bord du sommeil, elle entendit un cri venant du fond du couloir qui la réveilla en sursaut une fois de plus. Cassie s'assit et alluma sa lampe de chevet, écoutant anxieusement, se demandant ce qui se passait et si elle avait bien pensé à fermer sa porte quand elle était revenue dans sa chambre. Quand elle entendit le cri une seconde fois, elle reconnut la voix d'Ella. La fillette devait encore faire un cauchemar et malgré les consignes de Pierre de rester dans sa chambre, Cassie devait aller la consoler. Elle fouilla dans sa valise pour sortir sa robe de chambre, au cas où elle devrait passer du temps avec Ella, puis se dépêcha d'aller dans sa chambre. Ella, c'est moi. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je suis là. Cassie alluma la lumière et ferma la porte, au cas où les cris d'Ella alerteraient Margot. La dernière chose dont elle avait besoin, c'était d'une autre confrontation nocturne avec cette cinglée. Tu faisais un mauvais rêve? Ella était encore dans les affres de son cauchemar. Ses petits poings frappèrent Cassie et elle cria dans son sommeil Arrête, arrête de me faire mal Inquiète de ce qui aurait pu causer ce cauchemar, Cassie la poussa doucement à se réveiller. Tout va bien, la rassura-t-elle. Regarde, voilà ton nounours. Tu veux t'asseoir un moment pour être sûre de ne pas retourner dans ton rêve Ella était bouillante et son dos était trempé de sueur. Elle s'était presque enfouie sous les couvertures, ce qui aurait suffi à la surchauffer, mais Cassie espérait qu'elle n'avait pas non plus attrapé de fièvre. Est-ce que tu es malade s'inquiéta-t-elle. J'ai fait un horrible cauchemar, sanglota Ella. Je ne pouvais plus respirer, Cassie. Quelqu'un m'étouffait. C'était horrible. J'ai cru que j'allais mourir. Oh, hélas, ça a dû être si effrayant. Je suis désolée que tu aies fait ce cauchemar. Mais ce n'est pas réel. Écoute, tout va bien maintenant. Je crois que tu as dû te débattre pour respirer sous toutes les couvertures. Je n'aime pas non plus dormir avec des couvertures sur la tête. Veux tu que j'ouvre ta fenêtre pour laisser entrer un peu d'air? Ella acquiesça d'un signe de tête, et Cassie alla entr'ouvrir légèrement la fenêtre, afin qu'un souffle d'air frais s'infiltre à l'intérieur. Ce lever lui donna le vertige et la désorienta, comme si elle se regardait ouvrir la fenêtre de loin. Elle supposa que c'était une séquelle du stress. Je vais rester avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes, promit-elle. Elle aplanit l'oreiller d'Ella et l'aida à se mettre à l'aise. Et demain demanda Ella sans détour. Tu seras là demain Ou tu seras partie quand je me réveillerai Cassie se demanda si c'était Ella qui était restée devant sa chambre. Elle aurait pu regarder à travers le trou de la serrure en se tenant sur la pointe des pieds. Ou peut-être avait-elle simplement attendu dehors et entendu Cassie poser sa valise par terre et faire ses bagages Quoi qu'il en soit, sa supposition était d'une précision déconcertante et Cassie savait qu'elle allait devoir lui mentir pour la rassurer. Bien sûr que je serai encore là, la rassura-t-elle, sachant qu'elle avait l'intention de partir sitôt le jour levé. Le moins qu'elle puisse faire était d'attendre qu'elle plonge dans un sommeil tranquille. Alors elle lui raconta une histoire, choisissant celle qu'Ella disait être sa préférée. Après l'histoire, Ella semblait beaucoup plus calme, et Cassie espéra qu'elle avait oublié son rêve. Elle s'assit au bord du lit et attendit d'être sûre qu'elle dormait profondément. Elle écarta une mèche de cheveux de sa figure au cas où elle tomberait sur sa bouche et qu'elle rêverait de s'étouffer de nouveau. Puis elle fronça les sourcils en regardant plus bas. Était-ce une ombre sur son cou ou autre chose? En scrutant de plus près, Cassie découvrit la marque légère, mais indubitable, d'un bleu en formation. La colère l'emplit tandis qu'elle l'examinait. Quelqu'un, elle devinait parfaitement qui, avait fait ça à Ella, à peine quelques heures plus tôt. Elle imagina la scène, Margot criant après Ella pour la faire taire et pour qu'elle écoute. Mais comme elle n'avait pas écouté ou obéi, la blonde avait dû l'attraper par le cou. Peut-être avait elle déjà bu à ce moment là. Il semblait qu'elle en venait un peu trop vite aux mains quand elle était en colère. Ella avait dû être complètement traumatisée par l'expérience. Pas étonnant qu'elle pleurait quand Cassie est rentrée. Elle avait sans doute effacé l'incident de son esprit, mais dans son sommeil, son subconscience en était souvenue et avait essayé de chasser les démons. Cassie sentit une montée de rage si puissante qu'elle en eut peur. Étant la cadette, Ella était de loin la plus vulnérable à ce genre d'abus qui lui laisserait les cicatrices les plus profondes. Cassie décida qu'avant de quitter la France, elle allait dénoncer la famille aux autorités compétentes, en espérant que les abus de Margot puissent faire l'objet d'une enquête et être stoppés. Ce serait la dernière chose qu'elle pourrait faire pour aider Ella avant de tourner le dos à la famille Dubois pour toujours. Cassie retourna dans sa chambre, ayant toujours l'impression de vivre une expérience extracorporelle, et incapable de se débarrasser de la colère qui couvait encore en elle. Elle ne pensait pas pouvoir s'endormir dans cet état, mais elle savait qu'elle aurait besoin de toute sa vivacité d'esprit pour pouvoir partir à la première heure. Une nuit blanche ne lui ferait aucun bien. Elle se demanda si elle devait prendre un troisième comprimé, vu que le second n'avait fait que lui donner le vertige. Avant qu'elle n'y réfléchisse trop, elle le sortit du blister et l'avala à sec. Elle supposa qu'elle serait sonnée le matin, mais au moins, pour l'instant, elle pouvait se calmer et se reposer un peu. Après ce qui sembla être une heure d'inconfort à remuer sur le matelas et à se dire que le sommeil n'arriverait jamais, Cassie sombra directement dans un cauchemar. Elle suivait sa sœur aînée, Jackie, dans les bois. Les arbres étaient très sombres, leurs troncs noueux étaient proches les uns des autres, et il n'y avait trace d'aucun chemin. La journée, cela ressemblait plus au soir, était humide et froide, et Cassie voulait faire demi-tour parce qu'elle avait la forte impression que l'endroit où elles allaient était pire que ce qu'elle laissait derrière elle. Ne sois pas bête, lui dit Jackie. Bien sûr qu'on doit continuer. Tu n'as pas envie de retourner vivre avec papa, n'est-ce pas Souviens-toi de ce qui t'est arrivé là-bas. Mais cet endroit est dangereux, se plaignit Cassie. On ne peut pas vivre dans ces bois, il fait froid et noir. On n'a pas emporté de vêtements, il n'y a rien à manger. C'est effrayant ici. Jackie se retourna et fronça les sourcils comme elle aimait faire quand elle avait raison et Cassie avait tort. Je ne vais pas rester là pour que ces gens me fassent du mal. Tu peux y retourner si tu veux. Mais maintenant, je suis perdue. Je ne sais pas où est la sortie. Cassie regarda autour d'elle paniquée parce que les arbres se rapprochaient, leurs branches froides et sombres formant une cage autour d'elle. S'il te plaît, aide-moi, Jackie. Rentrons ensemble. Et puis, à son grand désarroi, Jackie se mit à se moquer d'elle. Pauvre petite fille trouillarde, regarde-toi. Tu ne peux même pas te défendre. Tu es faible et tu mérites d'être laissée seule ici. Je vais continuer, je n'ai pas peur. Reste ici et vois si ça te convient. Jackie se mit à rire, un rire désagréable, aigu, argentin, et Cassie lui courut après dans une colère noire. Les arbres se dégagèrent pour révéler un ravin profond derrière elle. Cassie aurait pu s'arrêter, mais ne le fit pas. Elle poussa Jackie de toutes ses forces et vit ses cheveux voler, ses membres battre l'air, tandis qu'elle tombait dans l'abîme. Scrutant les sombres profondeurs du ravin, Cassie vit le corps de sa sœur gisant là, immobile. Elle se réveilla, étouffant un cri. Où était-elle Elle, elle n'était pas dans son lit. Désorientée, Cassie regarda autour d'elle. L'obscurité était presque totale, seul un ray de lumière brillait sous la porte. Elle n'avait pas fait de somnambulisme depuis des années, mais elle n'avait pas été aussi stressée depuis longtemps. Elle en avait fait périodiquement dans les moments difficiles, quand elle était plus jeune. Elle s'était toujours sentie complètement désorientée, comme si on l'avait ramenée à la vie après l'en avoir arrachée et qu'elle avait raté quelque chose d'important entre-temps. Elle n'avait jamais été capable de se débarrasser de ce sentiment, même après que le médecin lui avait expliqué que son esprit conscient était inactif pendant le somnambulisme, comme c'était le cas lorsqu'elle était endormie profondément. Elle tendit la main, troublée par l'objet qui brillait devant elle, et se retrouva à saisir une poignée de porte en laiton brillant. Cassie ôta sa main du métal froid, réalisant soudain où elle était. Elle avait marché jusqu'à la porte de la chambre de Pierre peut-être, dans son rêve, avait elle essayé de se venger de Margot. Ça se serait vraiment mal passé pour elle si elle avait ouvert la porte. Elle imaginait la scène que Margot aurait faite si elle était entrée dans sa chambre. Elle fit rapidement demi tour, trouvant bizarre de retracer un chemin qu'elle avait parcouru en dormant et dont elle ne se souvenait pas. Elle comprit qu'avec la visite nocturne de Marny et tout ce qui s'était passé ce soir là, elle était trop préoccupée pour penser à verrouiller la porte de sa chambre, et c'est pourquoi elle avait pu la quitter si facilement. Si elle avait verrouillé la porte et posé la clef sur sa table de chevet, c'était sûr qu'elle n'aurait jamais marché aussi loin. Son rêve semblait si réel. Elle se souvint que la suffisance sur le visage de Jackie s'était transformée en terreur quand elle avait réalisé ce que Cassie allait faire. Et Cassie ne s'était pas arrêtée. Ça ne lui avait pas traversé l'esprit de faire preuve de compassion et de donner une chance à Jackie. Elle se sentit affreusement gênée, comme si elle avait puisé dans un filon maléfique dont elle ignorait la présence. De retour dans sa chambre à coucher, elle alluma la lumière et, avec le confort de son éclat repoussant l'obscurité, réussit finalement à se rendormir. Peut-être eut elle d'autres rêves, mais son sommeil était trop profond pour s'en souvenir au réveil. Un cœur d'oiseau lui indiqua que l'aube approchait, bien que le soleil ne soit encore qu'une faible lueur orange à l'horizon. Cassie consulta l'heure sur son téléphone et vit, avec un frisson d'angoisse, qu'il était presque sept heures du matin. Il fallait qu'elle y aille. Elle n'était pas sûre que Pierre soit déjà debout, mais s'il ne l'était pas, elle le réveillerait. Elle s'attacha les cheveux et rangea sa trousse de maquillage, après avoir décidé de ne pas se maquiller pour sa confrontation avec Pierre. Même si elle était très pâle. Elle avait une ecchymose sur la joue à cause de la lutte avec Margot et une profonde écorchure au poignet qui l'élançait douloureusement. Elle la regarda fixement, perplexe, réalisant qu'elle ne l'avait même pas remarqué la veille. Quand cela était-il arrivé Je m'en vais, se dit-elle devant le miroir. Elle réessaya avec plus de conviction. Pierre, je m'en vais. Je ne suis pas prête à travailler un jour de plus dans cette maison. J'aimerais utiliser le téléphone de votre bureau pour appeler un taxi, s'il vous plaît. S'il disait non, elle prendrait simplement ses bagages et partirait. Elle savait où se trouvait la pépinière et était capable de faire rouler sa valise sur cette distance. Pierre n'allait pas l'arrêter. Elle ne le laisserait pas faire. Elle s'assurerait d'être partie avant le réveil d'Ella, qui serait probablement dans une demi heure environ. Il était donc temps d'agir maintenant. Elle mit son passeport dans la poche de sa veste, prête à partir. Elle se sentait un peu nauséeuse et avait très soif, et se dit que c'était probablement dû à la triple dose de médicaments qu'elle avait prise. Étonnamment, le dosage plus élevé ne l'avait pas aidée à dormir. Alors qu'elle rangeait ses comprimés, les derniers objets qu'elle devait mettre dans son sac, elle comprit pourquoi. Embrouillée par l'emballage peu familier, elle s'était trompée de comprimés. Au lieu de prendre ceux qui provoquaient de la somnolence, elle avait gobé trois de ceux dont le médecin l'avait mise en garde, lui conseillant de ne prendre qu'un demi-comprimé par jour, car un surdosage pouvait causer des épisodes psychotiques. Pas étonnant qu'elle se sente bizarre ce matin. Avec un peu de chance, elle avait évité les pires effets en dormant, et les nausées commenceraient maintenant à s'estomper. Espérant qu'un verre d'eau l'aiderait, elle se rendit dans la salle de bain et but deux verres pleins. Puis Cassie releva le menton, prit son courage à deux mains, et marcha dans le couloir vers la chambre de Pierre, réprimant un frisson tandis qu'elle s'approchait de la porte close. Elle leva la main et toqua d'un coup ferme. Pierre? appela t-elle, ravie que sa voix soit stable et forte. Elle attendit, mais il ne vint aucune réponse. Pierre, c'est Cassie. Je dois vous parler d'urgence. Êtes vous réveillé? Toujours pas de réponse. Elle était certaine que frapper à la porte aurait réveillé Pierre ou Margot s'ils dormaient. Ce serait bien sa chance si aujourd'hui, entre tous les autres jours, il s'était levé plus tôt pour sortir. Eh bien, si tel était le cas, elle laisserait un mot dans son bureau et appellerait un taxi pour venir la chercher. Si Pierre n'était pas là, elle ne le laisserait pas faire dérailler ses plans. En fait, cela faciliterait son départ. Cassie ouvrit la porte, essayant de ne pas penser au mantra du jamais deux cent trois qui résonnait dans sa tête quand elle saisit la poignée en métal froid. La chambre était vide, et elle constata, à sa grande surprise, que le lit était fait, bien que le couvre-lit soit froissé comme si quelqu'un s'était assis dessus. La chambre était gelée, car la grande porte fenêtre était ouverte. Les rideaux de dentelle s'agitaient à l'intérieur, soufflés par l'air glacial du matin. Par la porte ouverte du bureau, elle entendit des froissements de papier et elle s'arrêta, se demandant si Pierre était là, mais elle réalisa que ce devait être le vent. Cassie ferma la porte derrière elle, ce qui diminua un peu le courant d'air. Elle frissonnait. C'était sinistre. Elle voulait vraiment donner formellement sa démission, pas se sauver en douce dans leur dos, mais il n'était manifestement pas là, alors elle n'avait pas le choix. Elle n'avait qu'à s'assurer que son mot ne laisse aucune place au doute ou à une mauvaise interprétation. Les paroles étaient une chose, les mots écrits en étaient une autre. Le bureau était dans un désordre total. Le vent avait soufflé une pile de papier qui s'était éparpillée partout sur le sol. Tandis qu'elle regardait, une nouvelle feuille volta sur la surface en acajou. Cassie se dépêcha de retourner dans la chambre pour fermer la porte-fenêtre. Le soleil se levait, déjà lumineux. La journée était parfaitement claire, bien que venteuse, et elle contempla l'exquise tapisserie de la campagne visible à des kilomètres de ce haut point de vue. Les collines vallonnées, les forêts majestueuses, bien que d'ici elles aient l'air petites, le damier coloré des champs et des vignes. Elle aurait aimé avoir plus de temps pour découvrir la beauté de cette région et d'une manière plus agréable, si seulement les choses avaient pu être différentes. Mais elles ne l'avaient pas été. Une des chaises en fer forgé près de la rambarde du salon s'était renversée. Cassie sortit, se crispant sous la rafale glacée qui la cingla, arrachant des mèches à sa queue de cheval. Elle se pencha pour ramasser la chaise et quelque chose attira son attention, loin en dessous. C'était une tache turquoise vive sur les dalles. Perplexe, elle se pencha et regarda en bas. Agrippée au balcon, les mains soudain moites, Cassie réalisa ce qu'elle voyait. Ce beau et cher manteau, ses membres étalés, une seule chaussure vers citron gisant toute seule, délogée par la chute. « Oh mon Dieu !» exhala Cassie. Elle fixa cette vue épouvantable pendant des secondes interminables, tandis que son cerveau luttait pour accepter la réalité de ce qui se trouvait là. Puis, l'estomac de plus en plus brassé, elle se retourna et tituba dans la chambre les jambes en coton. Elle parvint juste à gagner l'opulente salle de bain avant d'être violemment malade. Chapitre 20. Un vomi aigre et chaud brûla la gorge de Cassie. Elle vomit dans les toilettes en porcelaine blanche, se rappelant clairement l'horreur qu'elle avait vue dehors. Le corps de Margot gisait sur les dalles, immobile. Une de ses jambes était pliée dans un angle affreux. Margot devait sûrement être morte, mais peut-être par miracle était-elle encore en vie, mais inconsciente ou comateuse. Cassie cracha dans la cuvette des toilettes et s'essuya la bouche. Malgré la froideur de la pièce, une sueur poisseuse s'était répandue sur son front et ses aisselles. Elle se sentait encore plus étourdie qu'avant, et quand elle quitta la salle de bain, elle se dirigea de nouveau vers le balcon, désorientée, avant de faire demi tour et de se précipiter, jambes tremblantes, vers la porte de la chambre. Pierre. Cria t-elle en courant dans le couloir Pierre, où êtes vous? Où était il? et, plus important encore, où était il quand c'est arrivé? Sentant la nausée lui tordre à nouveau les entrailles, Cassie se demanda si elle ne devrait pas se poser la même question. Après tout, elle avait fait ce rêve bizarre et troublant où elle avait vu un cadavre. Était-il possible qu'elle ait pu entrer dans la chambre de Pierre en somnambule et regarder par-dessus le balcon sans s'en rendre compte Mais comme il faisait totalement noir, elle n'aurait rien pu voir si bien. En ce cas, pourquoi le souvenir d'avoir poussé Jackie dans le ravin était-il si vif Cassie appela de nouveau Pierre, et des portes de chambre s'ouvrirent. Elle vit Antoinette sur le pas de sa porte, vêtue de sa chemise de nuit couleur pêche, le regard empreint d'une curiosité circonspecte. Marc jaillit de sa chambre, vif comme l'éclair, tenant un petit dinosaure. Où est papa cria-t-il. Papa, Cassie te cherche Il passa devant elle en trombe, mais elle réussit à l'attraper avant qu'il n'atteigne l'escalier. Puis elle se tourna vers Antoinette. S'il te plaît, Antoinette, est ce que Marc et toi pouvez retourner dans vos chambres et y rester? C'est important et très sérieux. Ne quittez pas vos chambres. J'expliquerai pourquoi dans une minute. Heureusement, l'urgence de son ton suffit à convaincre Marc, qui retourna dans sa chambre sans broncher. Cassie descendit l'escalier, s'agrippant à la rampe et trébuchant dans sa course. Elle arriva dans la cuisine essoufflée et la servante qui sortait un plateau du four leva les yeux avec curiosité. Où est Marny? Cassie sanglotait, les larmes brouillant ses yeux. Marny se précipita vers elle, inquiète, posant le panier qu'elle portait pour saisir par les épaules une Cassie chancelante. Qu'est-ce qu'il y a? demanda-t-elle. Que s'est-il passé, Cassie? Appelle une ambulance, appelle la police vite! s'étrangla Cassie. Margot était tendue par terre dehors elle a dû tomber du balcon, et je crois qu'elle est morte. Oh. Mon Dieu. Fit Marny. Elle ferma brièvement les yeux. Cassie remarqua qu'elle était devenue très pâle. Où est Pierre? demanda t-elle. Je ne sais pas. Il n'était pas dans la chambre. Il a dû sortir quelque part. D'accord, acquiesça Marny. Montre moi où elle est tombée. Cassie ne voulait pas s'approcher de ce corps étalé, mais elle savait qu'il fallait le faire. Faisant appel à toute sa volonté, elle sortit de la cuisine avec Marny. Elles passèrent par la porte de l'arrière cuisine et gagnèrent l'arrière du château, descendant encore deux volées de marches extérieures. Ce fut là que Cassie remarqua la pente abrupte sur laquelle la maison avait été construite. Cette vue incroyable depuis le balcon de la suite parentale signifiait qu'il y avait eu une chute de trois ou quatre étages sur le pavé en dessous. Marnie retint sa respiration quand elle vit le corps étendu sur les dalles décorées. Elle s'approcha avec hésitation, qu'assis sur ses talons. Celle-ci sentit remonter sa bile et eut de nouveau envie de vomir, même s'il ne restait plus rien dans son estomac. Elle pouvait voir que Margot était indubitablement morte. Sa bouche était ouverte, ses yeux vides. La mare de sang derrière sa tête s'était figée sur les dalles gris argent. Sa peau était blême. Et Cassie vit avec horreur que cela rendait encore plus visibles les bleus livides sur son cou exposé. Elle distinguait clairement les traces de doigts sur chaque marque violacée. Cassie pensa que Marnie marmonnait une prière tandis qu'elle s'agenouillait et saisissait le poignet de la femme. Pas de poux, confirma-t-elle, un frisson dans sa voix. J'appellerai la police, il n'y a pas besoin d'ambulance. Peux-tu rester avec les enfants pour le moment? Il vaut mieux qu'il reste en haut jusqu'à ce que la police ait fait son travail. Je pense que tu devrais y aller vite, car il pourrait devenir curieux. Cassie hocha la tête et repartit en hâte par où elle était venue. Elle arriva à l'étage juste à temps. Ella empruntait déjà le couloir vers la chambre de Pierre, ses cheveux tout emmêlés, appelant Papa Ella, revient. Cassie prit Ella dans ses bras et la ramena dans sa chambre, décidant qu'il serait plus sûr que les trois enfants puissent rester ensemble dans la même pièce. S'il te plaît, attends ici, Ella, dit-elle fermement, avant d'aller chercher Antoinette et Marc. Quelques minutes plus tard, ils furent tous réunis dans la chambre d'Ella. Cassie était à court de mots. En silence, elle détailla leurs expressions attentives. Ils avaient vu le comportement abusif de Margot et la bagarre de la veille. Ce serait leur dernier souvenir de Margot. Cassie se rappela comment elle avait empoigné le long masque de bois quand Margot l'avait attaquée, et comme elle l'avait lancé sur elle, visant son visage. Elle avait voulu lui faire du mal parce qu'elle pensait que la douleur pourrait peut-être lui faire entendre raison. En fait, elle avait voulu blesser Margot à cause de ce qu'elle avait dit, même si elle l'avait justifié comme étant de la légitime défense elle se rappelait comment elle avait couru derrière Margot avec une rage bouillonnante, ses propos moqueurs ancrés dans son esprit. Elle savait que Margot était assez grande avec ses talons et que le parapet était assez bas, alors elle l'avait poussé fort. Elle se dit que Margot avait essayé de crier, mais n'avait réussi qu'à gémir en basculant et en tombant dans le vide. Non, dit Cassie à voix haute. Ce n'était pas arrivé. Elle confondait le souvenir avec son rêve. Après tant de stress et le surdosage accidentel des mauvais médicaments, il n'était pas étonnant que les frontières entre l'imagination et la réalité soient devenues floues. Elle se souvint qu'Antoinette avait visé le genou de Margot et l'avait violemment frappée. Quand elle leur annoncerait la nouvelle, elle devrait garder un œil sur Antoinette. Il y a eu un accident, lâcha-t-elle enfin. Qu'est-ce qui s'est passé Papa va bien Sans qui elle là avec anxiété. Antoinette resta muette. C'est Margot. Elle est tombée cette nuit. Cassie déglutit. Était-ce son imagination ou Antoinette cachait-elle un sourire Elle s'est fait mal demanda Marc. Elle. Elle est passée par-dessus le balcon. Elle n'a pas survécu à la chute. Elle est morte. Nous devons attendre ici jusqu'à l'arrivée de la police. Elle dévisagea les enfants. À cette nouvelle, elle affondit en larmes, mais en revanche, Antoinette ne montra aucune émotion. Elle regarda calmement Cassie en retour. Marc fronça les sourcils. Que va faire la police demanda-t-il. Ils vont examiner Margot et l'emmener, répondit Cassie. Ses connaissances à ce sujet étaient trop sommaires pour en dire plus. Un nœud de terreur serra son estomac. Que s'était-il passé hier soir la surdose de médicaments lui avait brouillé la mémoire et il y avait des lacunes qu'elle ne pouvait pas combler. Elle se souvenait à peine d'avoir fait ses valises. Elle se dit qu'elle était allée dans la chambre d'Ella. Où était-ce la nuit précédente Avait-elle vraiment fait du somnambulisme ou cela faisait-il partie de son rêve Cassie savait qu'elle ferait mieux de tâcher de reconstituer une histoire cohérente de la veille au soir, car la police interrogerait sans doute tout le monde. Après tout, la balustrade en pierre était à hauteur de taille, et il aurait été impossible pour Margot de tomber accidentellement. J'entends papa! se réjouit Marc. Cassie ouvrit la porte de la chambre et entendit un brouhaha de voix en bas. Celle de Pierre en faisait effectivement partie. Je peux aller voir papa? demanda Ella en descendant du lit. Non, non, certainement pas. Pas maintenant. Cassie ferma la porte à nouveau. Il sera très occupé pendant un moment. Je suis sûre que la police va arriver d'une minute à l'autre. On peut prendre le petit déjeuner, Cassie? demanda Antoinette. J'ai plutôt faim. Cassie la dévisagea choquée. La nourriture était bien la dernière chose qui lui venait à l'esprit, et elle avait supposé que les enfants seraient trop bouleversés pour vouloir manger. Mais c'était clair que la nouvelle de la disparition de Margot n'avait pas affecté l'appétit d'Antoinette. Ou bien, pensa t-elle soudain, sa demande pourrait être un stratagème pour faire sortir Cassie de la pièce si Antoinette songeait à une bêtise quelconque. Tu peux attendre un peu demanda-t-elle. Je suppose que oui, soupira Antoinette. Cassie entendit de nouveau le claquement de la porte d'entrée et un cœur de voix. La police avait dû arriver. Si elle avait été dans sa propre chambre, elle aurait vu les voitures approcher, mais celles des enfants donnaient sur les jardins et les champs à l'arrière de la maison des pas montèrent l'escalier, puis passèrent, se dirigeant vers la suite parentale. La police devait inspecter la scène pour voir d'où Margot était tombée. Peut-être cherchait il aussi des indices dans la chambre elle même qui leur révéleraient ce qui s'était passé. Elle ne devait pas oublier de mentionner qu'elle avait ramassé la chaise tombée sur le balcon. Voulez vous que je vous lise une histoire? demanda t-elle aux enfants en s'efforçant de paraître joyeuse. Ils acceptèrent à contre-cœur, et Cassie choisit un livre qu'elle n'avait jamais lu à Ella, un conte de fées qui plairait aussi aux autres enfants et leur occuperait l'esprit, espérait elle. Distraite et troublée, elle trébuchait sur les mots, soudain incapable de comprendre le français de base qui était habituellement courant chez elle. Antoinette ne se concentrait manifestement pas sur l'histoire, et Ella, la figure dévastée, essayait d'écouter ce qui se passait à l'extérieur. Environ une demi heure plus tard, Marnie frappa à la porte. La police veut te parler, annonça t-elle, et Cassie aperçut derrière elle un homme maigre, aux cheveux couleur sable, en costume cravate. Il avait l'air sérieux et pas du tout compatissant. Marnie portait un panier de collations, et elle distribua des fruits et des pâtisseries aux enfants. Cassie se demanda si elle devait manger quelque chose. Elle n'avait pas faim du tout, mais ses étourdissements s'aggravaient, et elle se dit qu'un repas pourrait aider à les soulager. « Ce n'était pas le moment », décida-t-elle à contre-cœur. L'officier de police descendait déjà l'escalier. En le suivant, Cassie vit que la salle à manger servait de salle d'interrogatoire. Ce n'est qu'après être entré et avoir fermé la porte que l'inspecteur de police se présenta. « Je suis l'inspecteur Granger et voici ma collègue, l'inspectrice Bisset. » Il parlait anglais à la perfection. Cassie sourit nerveusement à la jeune femme en pantalon bleu marine qui installait un magnétophone. Nous avons interrogé votre employeur, M. Pierre Dubois, expliqua l'inspecteur Granger. Nous aimerions entendre votre version de ce qui s'est passé hier soir et ce matin. Préférez vous que l'entretien se déroule en français ou en anglais? En français, c'est très bien, dit Cassie en espérant qu'elle gagnerait quelque faveur auprès de ces deux policiers à l'air sévère. Bien qu'elle ait deviné que Pierre devait être le principal suspect, et elle était certaine que c'était lui qui avait commis ce crime, elle devina aussi qu'elle était soupçonnée. Les trous dans sa mémoire étaient pénibles et la rendaient très nerveuse. Elle ne voulait rien dire de travers ou semblait cacher quoi que ce soit. Bien, alors commençons. Asseyez-vous ici, face à l'inspectrice Bisset, et déclinez votre nom, votre date de naissance et votre adresse pour le dossier, s'il vous plaît. Les premières questions étaient de routine d'où elle venait, l'agence qui l'avait engagée, depuis combien de temps elle était dans la famille. Cassie remarqua que l'inspectrice Bisset eut l'air surprise quand elle dit qu'elle était ici depuis seulement trois jours. Ils lui parlèrent de ce qui s'était passé ce matin là, lui demandant ce qu'elle avait trouvé quand elle était entrée dans la chambre. Cassie mentionna la chaise renversée sur le balcon, qu'elle l'avait redressée et avait ainsi remarqué le corps en bas. Et pourquoi êtes-vous allé dans la chambre demanda l'inspecteur Granger. Je voulais demander si je pouvais utiliser le téléphone. Il est dans le bureau, dit Cassie. Elle ne voulait pas mentionner qu'elle allait appeler un taxi avec l'intention de partir. Cela semblerait sûrement suspect. Puis elle se rendit compte que tôt le matin en France, il serait minuit aux États-Unis, donc elle ne pouvait pas dire qu'elle voulait appeler qui que ce soit chez elle. Elle pourrait peut-être déclarer qu'elle essayait de contacter Jess la fille au père qu'elle avait rencontrée dans l'avion. Heureusement, la police ne lui posa pas d'autres questions sur l'appel téléphonique. Elle en fut soulagée, mais pas pour longtemps, car l'interrogatoire prit bientôt une autre tournure plus difficile. Dites nous ce que vous avez observé au sujet de la relation entre monsieur Dubois et madame Fabron, demanda l'inspecteur Granger. Je ne la connaissais que sous le nom de Margot, répondit Cassie. J'ignorais son nom de famille. Que devrait elle en dire? Elle se surprit en train de triturer la nappe avec ses doigts et s'arrêta aussitôt au cas où cela serait interprété comme un signe de culpabilité. Elle pourrait parler de l'étranglement violent qu'elle avait vu se produire dans leur chambre et de l'équipement de bondage dans le tiroir secret, mais elle devrait expliquer comment elle l'avait trouvé et cela pourrait mener sur une voie dangereuse. La police demanderait à juste titre pourquoi elle s'était introduite dans la chambre privée de son employeur. L'histoire du passeport volé semblerait farfelue et ne pouvait être confirmée que par elle-là, qu'elle voulait protéger. Tout était si compliqué qu'elle se sentit soudain à nouveau nauséeuse. Pourrais-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît demanda-t-elle. Je suis désolée, j'ai vomi après avoir vu le corps. J'ai encore des vertiges. Bien sûr. L'inspecteur Bisset se leva de son siège et apporta à Cassie un verre d'eau ainsi qu'une tasse de café noir. Cassie versa trois cuillères de sucre dans le café et le sirota, appréciant son goût sucré. « Il semblait avoir une relation instable, » dit-elle. « Pierre et Margot, je veux dire. Il y avait toujours un conflit sous-jacent dans la maison. Je les ai entendus se disputer plusieurs fois quand je me levais pour aller aux toilettes la nuit. »« Continuez, s'il vous plaît. » l'encouragea l'inspectrice Bisset. Elle paraissait si compréhensive que Cassie se retrouva à en dire plus. Pierre est très autoritaire, mais il ne semble pas avoir un lien émotionnel étroit avec les enfants, dit-elle. D'un autre côté, Margot semblait manquer beaucoup d'assurance. Les possessions matérielles et le statut lui semblaient importants. Elle réagissait très mal aux critiques. Vous l'aimiez bien La question venait de l'inspecteur Granger. Cassie hésita. Non, ce n'est pas que je ne l'aimais pas, mais nous n'étions pas proches. Je veux dire, j'étais seulement là pour faire un travail, pas pour être son ami. Je vois que vous avez un bleu sur le visage et as une écorchure sur votre bras. L'inspecteur Granger se pencha en avant. Comment ces blessures se sont-elles produites Je, je ne m'en souviens plus, répondit Cassie, décidant de jouer la sécurité, bien qu'elle sentît son cœur accélérer. Je suis plutôt enclin aux accidents. On nous a rapporté que vous vous étiez disputé avec Margot hier soir, dit l'inspecteur Granger et Cassie réalisa que la partie facile de l'interrogatoire était terminée. Elle se trouvait maintenant en terrain dangereux parce que Pierre avait déjà raconté à la police sa version des faits. « Oui, j'ai dû régler des affaires en ville. J'étais en retard parce que je m'étais perdue et Margot avait bu. Elle était en colère parce qu'elle était restée seule avec les enfants, parce que Pierre était aussi sorti un moment. »« Pierre a dit que c'était sérieux. Vous vous êtes mutuellement agressés physiquement. » Elle m'a giflé parce qu'elle était frustrée, mais la bagarre n'a duré qu'un moment. Puis Margot a trébuché sur ses talons hauts et a cassé une étagère, expliqua Cassie. Elle sentait son visage s'échauffer et se douta que les inspecteurs devaient le remarquer. Quand on a inspecté votre chambre tout à l'heure, on a remarqué que vos bagages étaient prêts. Aviez vous l'intention de partir aujourd'hui? Cassie dévisagea l'inspecteur Granger horrifié, regrettant de ne pas avoir eu la présence d'esprit de déballer ses affaires après cette catastrophe. Elle aurait dû réaliser qu'ils allaient inspecter toutes les pièces. J'allais partir ce matin, avoua t-elle. C'est pour ça que je suis allée dans la chambre, pour dire à Pierre que je démissionnais et pour appeler un taxi. Êtes vous déprimée, Cassie? intervint l'inspectrice Bisset. Non, je ne suis pas déprimée, mais je souffre d'anxiété. Prenez vous des médicaments pour ça? Il savait déjà ce qu'elle prenait, elle en était certaine. Oui, je prends différents comprimés. Ça n'a rien d'inhabituel, je veux dire, beaucoup de gens sont capables de mieux se gérer si leur anxiété est contrôlée, dit-elle, sur la défensive. Cassie était sûre que le médecin avait informé Pierre des médicaments qu'elle prenait. Ou la police aurait-elle fouillé ses bagages Peut-être bien. Elle réalisa avec un pincement au cœur que la posologie était inscrite sur les boîtes. Et la police aurait pu voir immédiatement qu'elle avait dépassé la dose recommandée. Cela aussi, il le savait probablement déjà. Nous comprenons qu'après votre dispute avec Margot hier soir, vous avez été envoyée dans votre chambre. Avez-vous quitté votre chambre pendant la nuit, Cassie Granger la fixait intensément. Non, dit-elle, j'étais là toute la nuit. Et puis, en un sursaut, elle se rappela que ce n'était pas le cas. Elle avait fait du somnambulisme et ce rêve saisissant. Elle s'était réveillée la main sur la poignée de la porte en laiton de la chambre de Pierre. Elle ne pouvait pas le dire à la police. Elle leur avouerait qu'elle était sur les lieux du crime sans aucun souvenir de ce qui s'était réellement passé. Elle ne connaissait même pas les faits. Êtes-vous sûre de ne pas avoir quitté votre chambre insista Granger. Cassie saisit un autre fragment de sa mémoire. Plutôt cette nuit-là, elle avait entendu Ella pleurer. Elle était allée la réconforter, avait vu l'équimose dans son cou et avait ressenti une colère incontrôlable à ce sujet. Attendez, je suis désolée, je suis sortie pendant la nuit, bredouilla-t-elle, voyant les inspecteurs échanger un regard et Granger griffonner sur son calepin. Ella, la plus jeune, faisait un cauchemar et je suis allée la réconforter. C'était hier soir, bien sûr. J'ai été tellement confuse avec tout ce stress. Pendant une minute, j'ai cru que c'était la nuit précédente. Elle en a eu plus d'une fois. Plus d'une fois en trois jours s'étonna Granger, mais il n'avait pas l'air incrédule, juste curieux. Oui, c'est en partie la raison pour laquelle j'ai décidé de partir, expliqua Cassie. Je ne pensais pas bien me débrouiller avec les enfants. La première nuit où j'étais ici, Margot. Elle s'interrompit. Expliquer comment Margot l'avait affrontée, maltraitée et giflée pour ne pas s'être occupée d'elle là assez vite, ne ferait que convaincre la police qu'il y avait eu une sérieuse animosité entre elles. Mais l'inspecteur Granger, les sourcils levés, attendait qu'elle continue. Le premier soir, Margot m'a dit que je devais toujours m'occuper des enfants. Le plus vite possible, peu importe à quel point j'étais fatiguée, corrigea-t-elle même si on m'a dit de rester dans ma chambre hier soir, je suis allée voir elle là quand je l'ai entendue pleurer. Les questions commençaient à faire paniquer Cassie. Elle se souvenait des menaces que Pierre lui avait proférées, sa promesse que si elle ne jouait pas son jeu, il dirait à la police qu'elle avait fouillé sa chambre et il l'arrêterait. Elle craignait sérieusement qu'il ne l'ait déjà fait, dans le but de dresser d'elle un portrait peu fiable et malhonnête. Ou pire encore, que Pierre n'ait pas besoin de le faire parce qu'ils avaient un bon ami dans la police locale, tout comme le médecin de la ville était son bon ami. Ce qui s'était passé était évident pour Cassie. Pierre et Margot s'étaient disputés hier soir. Elle était ivre et agressive à outrance et avait dû le pousser à la violence, ce qui l'avait mené trop loin. Il s'était battu et il l'avait poussé par-dessus le balcon dans un accès de rage. Puis il avait fui précipitamment afin de prouver qu'il n'était pas chez lui à ce moment-là. Pierre était riche et puissant, et Cassis savait qu'il n'avait aucun scrupule à utiliser sa richesse et son pouvoir pour obtenir ce qu'il voulait. Il avait beaucoup d'influence au sein de sa communauté. Même ceux qui parlaient mal de lui étaient réticents à discuter ouvertement des faits et avaient peur des répercussions, semblait-il. Si Pierre s'était créé un alibi, Cassis savait qu'il aurait besoin d'un autre suspect, car quelqu'un devait être accusé du crime. Si la police ne l'avait pas déjà arrêtée, cela signifiait que Pierre les menait dans une autre direction. Cassie pouvait déjà voir, d'après ce qu'il avait dit aux inspecteurs, comment son esprit fonctionnait, et elle se sentit malade de peur à mesure qu'elle comprenait ses plans. Qui de mieux à accuser de ce crime que la nouvelle arrivée dans la communauté, la fille au père instable, insignifiante et tout à fait remplaçable? Chapitre XXI Assise face aux inspecteurs, Cassie contempla ses mains serrées aux cuticules déchirées et mordues. Elle savait à quel point elle avait gâché l'interrogatoire. Une fois rassemblée, l'épreuve dépeignait un tableau bien sombre. La dispute qu'elle avait eue avec Margot et ses valises déjà prêtes parlaient d'elle-même Sa consommation excessive de médicaments et l'oubli de faits de base dont une jeune fille au père responsable aurait dû se souvenir, convainquait la police qu'elle n'était ni fiable, ni digne de confiance. Elle n'aurait pas pu choisir un pire moment pour prendre en surdose les mauvais médicaments. Ses trous de mémoire l'incriminaient, et si la police apprenait le rêve troublant qu'elle avait fait, s'il s'agissait bien d'un rêve, cela ajouterait du poids aux preuves contre elle. Elle sentit que le sort était déjà jeté, et elle n'arrivait pas à trouver un moyen de contrecarrer les preuves accumulées contre elle. Ces craintes furent confirmées par Granger. Nous devrons vous interroger à nouveau, après avoir parlé aux enfants. S'il vous plaît, restez dans la chambre avec eux quand vous irez à l'étage. L'interrogatoire des enfants semblait n'être qu'une simple formalité, une case à cocher avant que les processus n'entrent inexorablement en action. Elle pouvait imaginer ce qui se passerait ensuite. Elle se demanda s'il la menotterait ou non et priait pour qu'il ne le fasse pas. Elle savait qu'elle ne serait pas capable d'y faire face sans s'effondrer totalement, et si elle la voyait ça, elle serait traumatisée. Tandis que Cassie se levait, une idée téméraire lui vint à l'esprit, accompagnée d'un soudain regain d'espoir. Peut-être qu'elle pourrait simplement s'enfuir. Aurait-elle assez de temps Pourrait-elle quitter le château, peut-être même se rendre à l'aéroport avant qu'il ne s'aperçoive de son absence Comme s'il avait lu dans ses pensées, l'inspecteur Granger se racla la gorge. Nous allons vous demander de nous remettre votre passeport maintenant. La main droite de Cassie tomba automatiquement dans la poche de sa veste où il était bien à l'abri. Elle vit que l'inspecteur avait remarqué son geste. Il savait qu'elle avait le passeport sur elle. Elle ne pouvait pas gagner une minute de plus. Combien de temps en aurez vous besoin? demanda t-elle. Sa dernière lueur d'optimisme, que peut-être il n'en ferait qu'une photocopie, fut étouffée par sa réponse brusque. Nous le garderons jusqu'à la fin de l'enquête. Avec un désespoir glacé au creux du ventre, Cassie le remit, espérant obtenir un reçu officiel, mais cela ne semblait pas faire partie du protocole. Granger le prit tout simplement. Cela la rendit doublement nerveuse. Elle n'avait maintenant aucune preuve de séjourner légalement dans le pays, ni aucune idée de l'endroit où le passeport serait conservé. Et s'il le perdait ou qu'il disparaissait Granger l'accompagna dans la chambre d'Ella. Marnie, qui surveillait les enfants, remarqua le visage décomposé de Cassie. Elle lui adressa un sourire compatissant et, en partant, lui serra la main en guise de soutien. Le geste d'amitié inattendu lui fit monter les larmes aux yeux. L'équipe de la scène de crime travaille toujours dans la maison, alors ne quittez pas la pièce. Veuillez me suivre, mademoiselle. s'adressa Granger à Antoinette. Pendant qu'elle suivait le détective, Cassie se demanda si l'équipe médico-légale allait relever les empreintes digitales dans la chambre. Si c'était le cas, il trouverait beaucoup des siennes là-bas. Elle avait touché de nombreuses surfaces dans la recherche effrénée de son passeport. La présence de ces empreintes confirmerait leur opinion sur sa malhonnêteté. Bien que mourant de faim, elle se sentait plus nauséeuse que jamais. Elle ramassa l'assiette de nourriture. Mais à la vue des croissants à la crème, des fruits et des pains au chocolat que Marnie avait apportés, elle eut envie de vomir. Elle repoussa l'assiette. Marc était plongé dans une bande dessinée, mais Ella la regardait avec curiosité. Cassie, t'es contrariée demanda-t-elle. Cassie soupira. Elle voulait protéger Ella du résultat qui allait probablement se produire. Mais il n'y aurait aucun moyen de lui cacher la vérité lorsque Cassie serait escortée jusqu'à la voiture de police. Oui, dit-elle, les inspecteurs ne savent pas où j'étais hier soir. Ça veut donc dire que je suis ce qu'on appelle un suspect, et que je pourrais partir avec eux tout à l'heure. Si c'est le cas, je ne sais pas quand je reviendrai. Le front d'Ella se plissa, et sa lèvre inférieure trembla, mais au soulagement de Cassie, elle n'éclata pas en larmes. Prends une fraise. Dit Cassie en lui présentant l'assiette. Elle espérait que la nourriture remonterait le moral d'Ella, ou du moins lui apporterait une distraction. Ella sembla plus calme en grignotant la fraise, mais le froncement de sourcils ne la quitta pas. Quelques minutes plus tard, Antoinette fut de retour et Granger redescendit avec Marc dans son sillage. Antoinette avait l'air posée et contente d'elle, comme si l'interrogatoire avait été un test qu'elle avait facilement réussi. Devant son expression suffisante, Cassie sursauta au souvenir d'Antoinette qui disait. Je pourrais la tuer. C'était il y avait deux jours à peine, après que Margot l'eût agressée verbalement pendant le dîner. Cassie savait à quel point la blonde pouvait être méchante. Elle n'avait pas hésité à dire des choses terribles à Antoinette, même en présence des autres. Qu'avait elle dit hier soir pour faire fondre Antoinette en larmes? Cassie se demanda si une enfant de douze ans pouvait pousser une femme adulte sur un balcon à hauteur de taille. Elle ne croyait pas qu'Antoinette y serait parvenue si Margot s'était défendue, mais elle n'avait peut-être pas eu le temps de le faire. Elle eut une vision de Margot seule sur le balcon, accoudée sur la rambarde. À faire quoi? Peut-être qu'elle était en train de vomir, ou de fumer une cigarette, ou simplement de réfléchir à sa vie. Une franche poussée par derrière aurait pu envoyer une femme ivre par-dessus le parapet, surtout si elle ne s'y attendait pas. Cela aurait pu être une belle coïncidence, mais Cassie ne connaissait que trop bien le talent d'Antoinette pour profiter d'une situation. Compte tenu de cette aptitude, elle était certaine qu'Antoinette avait tout raconté à la police sur la bagarre entre Cassie et Margot. Elle aurait même pu exagérer la gravité de la situation, ce qui aurait jeté un doute supplémentaire sur la version de Cassie. « Que t'ont demandé les inspecteurs » demanda-t-elle à Antoinette. « Pas grand-chose. » Antoinette lui fit un sourire énigmatique, comme si elle sentait l'anxiété de Cassie. De toute évidence, elle n'allait pas du tout la rassurer. Dix minutes plus tard, Marc revint et se fut autour d'elle-là. Elle suivit Granger docilement en bas et Marc retourna à sa bande dessinée, guère troublée par son expérience. Cassie supposa qu'ils avaient simplement confirmé qu'il était au lit et endormi à ce moment-là. Ils durent attendre un certain temps avant que l'interrogatoire d'Ella ne s'achève. Cassie se demanda si elle avait pleuré en étant interrogée. Elle espérait qu'ils avaient été bienveillants envers la fillette et n'avaient pas essayé de l'intimider pour obtenir des réponses. Quand elle entendit les pas de Granger, la nervosité se dissipa en elle. Elle prit une grande respiration, essayant de se préparer à ce qui l'attendait. À sa grande surprise, l'inspecteur était seul. Elle s'était attendue à ce qu'il ramène là. Venez avec moi, s'il vous plaît, dit-il à Cassie. La scène a été nettoyée, et l'équipe médico-légale a fini son travail, donc les autres enfants peuvent retourner dans leur chambre maintenant. Cassie voulait avertir Antoinette et Marc de ce qui pourrait arriver mais sa bouche était sèche et elle n'arrivait pas à trouver les bons mots. Elle ne pouvait même pas demander à Antoinette de s'occuper d'elle là et de s'assurer qu'elle ne regarde pas par la fenêtre, parce qu'elle ignorait où était elle là. Quand ils arrivèrent dans la salle à manger, Cassie vit qu'Ella était toujours là. Elle était assise à côté de l'inspectrice Bisset, lui tenant la main. Granger fit signe à Cassie de s'asseoir pendant qu'il parcourait ses notes d'interrogatoire. Cassie, Ella Dubois nous a dit que vous vous êtes occupé d'elle hier soir, alors qu'elle pleurait, et que vous avez dormi le reste de la nuit dans sa chambre. C'est exact Abasourdi, Cassie dévisagea Ella, qui lui rendit innocemment son regard. Cassie n'en croyait pas ses oreilles. C'était une planche de salut inattendue. Bien que le témoignage d'une fillette de cinq ans ne tienne pas la route devant un tribunal, pour l'instant cela lui donnait un alibi et corroborait également son récit des événements de la nuit précédente. Peut-être que cela l'avait aidée à se racheter aux yeux de la police. Après avoir gâché l'interrogatoire, elle avait besoin de toute l'aide qu'elle pouvait obtenir. Comme son récit de la nuit précédente avait été très fragmenté, elle n'avait pas vraiment dit à la police qu'elle était retournée dans sa chambre après s'être occupée d'Alla. Cette omission jouerait en sa faveur. Elle devrait juste faire attention à ce qu'elle dirait à partir de maintenant, et comment elle le formulerait. Ne vous l'ai je pas dit? demanda t-elle, l'air surpris. Ella est très perturbée par ses cauchemars. Elle est terrifiée à l'idée qu'ils se reproduisent. J'ai découvert la première nuit où je suis arrivée ici qu'elle ne pouvait se rendormir que si je restais avec elle. Savez vous à quelle heure vous êtes allé dans la chambre d'Ella? demanda Granger. J'ai fini de fermer mes valises vers vingt et une heures, puis je me suis couché, et, alors que j'allais m'endormir, j'ai cru entendre un bruit devant ma chambre. J'ai ouvert la porte pour voir si un des enfants avait besoin de moi. Il n'y avait personne, mais j'ai entendu Pierre et Margot se disputer dans leur chambre, raconta Cassie lentement. Puis je me suis remis au lit. La dispute m'avait contrariée, et je continuai de tendre l'oreille pour les enfants. Après tout, si j'avais entendu les cris, ils auraient pu les entendre eux aussi, et ça aurait été affligeant pour eux. Elle vibissait, hochait la tête et ressentit un soupçon d'encouragement. Je me souviens m'être demandé, quand je suis allée dans la chambre d'Ella, si ses voix coléreuses avaient pu provoquer son cauchemar. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de faire des cauchemars après avoir entendu des disputes familiales. C'est très troublant à un niveau profond, surtout pour un jeune enfant. Car ça érode son sentiment de sécurité. Bisset la regardait maintenant avec une certaine sympathie. La chronologie. Avez-vous une idée de quand le cauchemar d'Ella s'est produit lui rappela Granger. Même si sa voix n'avait plus un ton accusateur et qu'il se montrait soigneusement neutre, Cassie était certaine qu'il attendait qu'elle fasse une erreur. Elle était certaine qu'il ne se fierait pas à son récit des événements. Pardon, pardon, je me suis égaré. Le timing. J'allais m'endormir quand elle a crié. C'était donc un peu de temps après m'être recouchée. Granger soupira. Vous n'avez pas consulté d'horloge ou votre téléphone Cassie allait dire que non quand dans un flash un autre souvenir lui vint à l'esprit. Attendez, dit-elle brusquement, et les deux inspecteurs la regardèrent avec un intérêt soudain. La lune. Cassie ferma les yeux essayant d'invoquer les détails. Je m'en souviens maintenant. Ella voulait de l'air. Elle s'était enfouie sous les couvertures et elle était brûlante, si chaude que j'ai cru qu'elle avait peut-être de la fièvre. Quoi qu'il en soit, elle avait du mal à respirer, alors j'ai légèrement ouvert sa fenêtre et ce faisant, j'ai remarqué que la lune était juste au-dessus de l'horizon, touchant presque les collines. Je ne sais pas si elle était ascendante ou descendante. Si je n'avais pas été aussi stressé au sujet d'Ella, j'aurais passé un peu de temps à la contempler parce que c'était magnifique. J'aurais dû vous le dire plus tôt, mais ça m'est sorti de l'esprit. Elle se rappelait maintenant que la lune avait un air plutôt étrange, elle aussi. En y repensant, elle eut envie de frissonner sans savoir pourquoi. C'est utile, opina Granger. C'est imprécis, mais ça nous donne une heure approximative. Il griffonnait furieusement des notes et Cassie se doutait qu'il allait établir une chronologie. Elle n'avait aucune idée de l'heure à laquelle Pierre aurait quitté le château. Ou prétendait l'avoir fait, ni même de l'heure exacte à laquelle la mort de Margot avait pu être déterminée. Mais le témoignage d'Ella semblait l'avoir sauvé pour l'instant. Les inspecteurs échangèrent un coup d'œil, et le nœud serré dans l'estomac de Cassie se relâcha juste un peu, tandis que Bisset faisait un léger signe de tête. Nous n'aurons pas besoin que vous veniez pour d'autres questions pour le moment, dit Granger d'un ton décisif, et Cassie eut envie de fondre en larmes de soulagement. Cependant, vous devez rester sur les lieux. Nous conserverons votre passeport au moins quelques jours de plus. Et nous pourrions avoir besoin de vous interroger à nouveau. Je m'inquiète pour mon passeport. Il a déjà disparu de ma chambre une fois et j'étais très stressée jusqu'à ce que je le retrouve, plaida Cassie. N'y a-t-il aucun moyen que je puisse le récupérer Avant que Granger ne dise quoi que ce soit, Cassie put voir sur son visage que ce n'était pas une option. C'est la procédure normale que nous suivons dans toute enquête pour tout témoin capital qui n'est pas un citoyen français. Cependant, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il sera gardé en lieu sûr et nous resterons en contact. Cassie supposa que c'était la seule assurance qu'elle allait avoir. Mais au moins, grâce à elle là, elle était libre de quitter la pièce, à défaut du pays. Avant de partir, Granger lui remit une carte de visite avec son nom, son numéro de téléphone et son e-mail. L'email lui était inutile au château, mais au moins elle pouvait appeler l'inspecteur si elle se souvenait d'un détail important. Cassie prit la main d'Ella et elles sortirent ensemble de la salle à manger. Elle se sentait faible, mais soulagée en quittant la pièce. La porte fut à peine fermée qu'elle entendit Granger et Bisset parler à voix basse. À présent qu'elle ne s'inquiétait plus de son arrestation imminente, Cassie avait une autre préoccupation. Ella! Dit-elle doucement, tandis qu'elle montait à l'étage. Oui. Ella la regarda avec confiance. Pourquoi tu as dit que j'étais dans ta chambre toute la nuit Ella haussa les épaules, apparemment guère troublée par ce qu'elle avait dit. J'ai pensé que c'était le cas, dit-elle simplement. T'as dit que tu ne me quitterais pas, hein Cassie fronça les sourcils, mal à l'aise devant la réponse d'Ella. La fillette pensait-elle vraiment qu'elle était restée avec elle toute la nuit Peut-être se créait elle une réalité plus réconfortante pour elle même, où les gens qu'elle aimait ne disparaissaient pas soudainement. Ou, plus troublant, elle avait délibérément menti aux inspecteurs pour garder Cassie avec elle. Quoi qu'il en soit, bien qu'elle soit toujours suspecte, les paroles d'Allah avaient donné à la police suffisamment de doutes raisonnables pour ne pas l'arrêter sur le champ. Cela signifiait sûrement que la police se concentrerait de nouveau sur Pierre. Cassie était certaine qu'on demanderait à Pierre d'accompagner les inspecteurs pour plus de questions. Alors qu'elle déballait quelques poupées pour qu'elle la joue avec, elle se demanda ce qu'elle devait dire aux enfants. Il vaudrait peut-être mieux ne pas rentrer dans les détails et dire que Pierre était sorti. Cassie aida Ella à arranger les poupées en cercle en les équilibrant sur des chaises en bois. Elle prenait le thé. Ella bavardait joyeusement toute seule pendant qu'elle faisait semblant de servir le thé. Elle ne semblait pas du tout fatiguée par sa rencontre avec la police et Cassie se demanda à nouveau si elle avait menti délibérément. Lorsqu'elle entendit des voix dans le vestibule, Cassie se leva et courut dans sa chambre où elle avait une meilleure vue sur ce qui se passait devant la porte d'entrée. En regardant par la fenêtre, elle aperçut les deux inspecteurs se diriger vers une Citroën blanche. Bisset mit une paire de lunettes noires et s'installa au volant. Granger, qui portait une grande mallette, ouvrit le coffre et la rangea à l'intérieur avant de se hâter vers le côté passager, resserrant sa veste contre les bourrasques de bruine froide. Pierre n'était pas avec eux, donc il n'allait pas l'interroger à nouveau. Où en était l'enquête Cassie serra les lèvres, se demandant si Pierre avait vraiment la police locale dans sa poche comme elle le craignait. Et si oui, ce que cela signifiait pour elle. En observant le départ de la berline banalisée, Cassie se pencha sur sa propre situation. Son passeport n'étant pas à sa disposition, elle était prisonnière chez Pierre. Il savait que ses efforts pour imputer la responsabilité de la mort de Margot sur Cassie avaient échoué. Elle se demandait si Pierre serait en colère à ce sujet, ou s'il essaierait de résoudre la situation d'une autre façon. Alors que la Citroën s'en allait, elle eut la chair de poule en pensant à ce qu'une autre façon pourrait signifier. Réalisant que son souffle avait embué la fenêtre de la chambre, elle recula. Cela ne servait à rien de regarder à travers la vitre embuée. La police était partie, la laissant dans une maison où une mort suspecte s'était produite, sans aucun moyen de s'échapper. Cassie tenta de se calmer en appliquant une pensée rationnelle elle était sûre que s'il y avait eu suffisamment de preuves, la police aurait arrêté Pierre, ou du moins l'aurait emmené pour un interrogatoire supplémentaire. Cela signifiait peut-être qu'il y avait des facteurs en jeu qu'elle ne connaissait pas. Quelqu'un d'autre pourrait être suspect, ou la police pourrait même penser que c'était accidentel. Pour autant qu'elle sache, Pierre avait vu Margot pour la dernière fois danser follement sur le balcon avec une bouteille de vodka à la main. Si elle pouvait en savoir plus, elle saurait si elle était en danger ou non. Malheureusement, Pierre était la seule personne qui pouvait lui donner cette information. Cassie aurait préféré l'éviter complètement. L'idée de lui en parler commençait à lui donner les mains moites. Elle devrait s'assurer qu'il ne devienne pas méfiant. Elle devait poser des questions innocentes, tout en laissant entendre qu'elle ne pensait pas qu'il soit impliqué. Si elle était capable de marcher sur cette corde raide sans provoquer sa colère, alors sa mission serait un succès. Cassie décida qu'elle ferait mieux de le chercher maintenant avant de perdre son sang-froid. Chapitre XXII Bien qu'elle eût préféré rester loin de la suite parentale, Cassie savait qu'elle devait y aller, et comme c'était l'endroit le plus proche où Pierre pouvait être, elle devait la vérifier en premier. Elle s'engagea dans le couloir, espérant qu'il soit ailleurs et qu'elle n'ait pas à entrer. Dès qu'elle franchit l'angle, elle vit que la porte était ouverte. Cassie s'approcha avec hésitation, réalisant que c'était l'occasion pour elle de voir si la police avait examiné la pièce à fond. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et constata, soulagée, qu'elle avait l'air exactement comme elle l'avait vu plus tôt. Elle ne vit aucune trace de poussière d'empreinte digitale. Bien qu'elle n'en ait jamais vu dans la vraie vie, elle savait, d'après les livres qu'elle avait lus, qu'elles étaient gris foncé et avaient l'air très sales. Il n'y avait aucune trace de poudre gris foncé dans la pièce, ce qui, espéra-t-elle, signifiait que la police n'avait pas jugé nécessaire de relever les empreintes digitales. Cassie se demanda si la porte ouverte indiquait que Pierre pourrait être dans le bureau. Elle l'appela doucement, mais il n'y eut pas de réponse. Elle avait déjà fait demi-tour quand un bruit l'arrêta net dans son élan. C'était la sonnerie forte et persistante du téléphone. L'appareil sonnait et sonnait. Trois sonneries, quatre, cinq. Il doit y avoir un répondeur, pensa Cassie, ou un autre téléphone ailleurs dans la maison sur lequel on pourrait répondre à tout moment. Malgré tout, elle s'avança sur la pointe des pieds dans la chambre, traversa le tapis décoré et entra dans le bureau. Ce pourrait être l'inspecteur Granger l'appelant pour la prévenir de quelque chose. Ça pourrait même être Zane continuant à la harceler. La pensée de Zane lui donna le courage de décrocher le téléphone. Allô? lança t-elle avec hésitation. Il y eut un bref silence, puis une voix d'homme se fit entendre. Margot? c'est Margot? Effrayée d'entendre le nom, Cassie faillit faire tomber le combiné. Non, le mot sortit plus fort qu'elle ne le souhaitait. Elle marqua une pause, se demandant quoi dire ensuite et comment annoncer la nouvelle à cette personne. Elle est Cassie était sur le point de lui dire. Elle est morte. Mais alors qu'elle allait parler, il y eut un déclic et l'interlocuteur raccrocha. Elle reposa soigneusement l'appareil sur sa base et quitta le bureau, se demandant qui avait appelé et pourquoi. Elle avait voulu en dire plus après s'être remise du choc de l'entendre demander Margot, mais l'homme ne lui avait pas donné la chance d'ajouter quoi que ce soit. Il ne savait manifestement pas que Margot était morte. La police aurait déjà prévenu sa famille, donc ce devait être quelqu'un d'autre. Le coiffeur de Margot, son bijoutier, son couturier. Les idées, limitées par sa connaissance basique de la blonde, lui traversèrent l'esprit, mais elle les rejeta toutes pour la même raison. Un correspondant innocent aurait certainement écouté ce que Cassie avait à dire. Cet homme n'avait pas écouté, il avait raccroché précipitamment. Qu'avait-elle appris d'autre de cette brève conversation Il ne connaissait pas Margot suffisamment bien pour reconnaître sa voix. Et il y avait eu des bruits de fond quand il avait prononcé Margot. Cassie avait entendu un autre téléphone sonner au loin, ce qui signifie qu'il aurait pu appeler d'un bureau. Cassie ne pouvait pas en dire plus, mais elle décida qu'il serait plus sage de ne pas parler à Pierre de cet étrange appel. Il serait plus censé d'en informer l'inspecteur Granger quand il se reparlerait. Avant de descendre, Cassie passa dans les chambres des enfants pour voir s'ils avaient besoin d'elle. Ella était encore à s'amuser avec ses poupées, mais la chambre de Marc était vide. Cassie espéra le trouver en cherchant Pierre elle savait les ravages que Marc était capable de causer si on le laissait sans surveillance pendant un certain temps. Antoinette répondit poliment à son toc-toc par un Entrez Cassie fut frappée une fois de plus par le calme et la sérénité d'Antoinette. Elle était allongée sur son lit en train de lire, avec une tasse de cacao sur la table de chevet, comme si rien au monde ne lui importait. Est-ce que ça va Je peux t'apporter quelque chose Sans qui, Cassie plus tard peut-être, répondit froidement Antoinette. Je lis mon livre maintenant, merci. Cassie descendit, décidant que son premier arrêt serait le garage, pour vérifier si Pierre était à la maison ou s'il était sorti. Elle sortit par la porte d'entrée dans la fraîcheur grise et venteuse du début de l'après midi. Le vent froid la cinglait à travers sa veste légère, et elle serra ses bras autour d'elle pour se réchauffer, tout en filant vers le garage. Un coup d'œil rapide lui confirma que toutes les voitures étaient à leur place. En quittant le garage, Cassie entendit une forte explosion dans la serre voisine. Elle sursauta au bruit, son cœur battant la chamade, et se rendit compte à quel point ses nerfs étaient fragilisés. Le moindre stress la poussait à bout. Le bruit évoquait un bruit de glace. Fronçant les sourcils, elle se dirigea vers la serre. Marc s'était rendu à l'arrière de la serre. Il ramassait des pierres dans le verger et les lançait sur les grandes vitres. Il en avait déjà brisé trois, et alors que Cassie se précipitait vers lui, il réussit un coup parfait sur une quatrième avec une pierre de la taille d'un poing. Elle perfora la vitre, laissant un trou déchiqueté. Marc, viens ici. Tu ne dois pas faire ça. Cria Cassie horrifié par l'ampleur de la destruction. Ton père va être en colère. Voyant que cela n'avait pas sur lui l'effet désiré, Cassie réessaya. Et les plantes vont avoir froid. Tu ne veux pas que les pauvres plantes aient froid, Marc, n'est-ce pas Heureusement, le bien-être des plantes s'avéra être un argument plus convaincant. Marc abandonna le tas de pierres qu'il avait soigneusement ramassé et accourut vers elle. Cassie, j'ai faim. J'ai été à la cuisine demander à manger à Marnie, mais elle n'était pas là. Ok, viens avec moi. Voyons si on peut te trouver quelque chose. Elle reprit le chemin autour de l'avant de la maison plutôt que de prendre le raccourci par l'arrière, car cela l'amènerait devant l'endroit où elle avait vu le corps de Margot. En entrant dans la cuisine, Cassie réalisa que c'était la première fois qu'elle la voyait vide. Pierre ne voulait manifestement pas que le personnel regarde pendant que la police ramassait le corps de Margot, et elle supposa qu'il leur avait donné congé pour le reste de la journée. En ouvrant le réfrigérateur, elle découvrit un grand plat couvert de sandwichs et une grande marmite de ragoût de bœuf. Elle fourra quelques sandwichs dans une boîte. « Tu veux bien emmener ça en haut, Marc, pour les partager avec tes sœurs J'arrive dans une minute et j'adorerais jouer aux petits soldats avec toi. » Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il prit la boîte. « Mais Cassie, il y a juste assez de sandwichs ici pour moi. » Avec un gloussement victorieux, il fila à l'étage, et au moment où il s'éclipsa, Cassie entendit le crissement des graviers et des voix dehors. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit et Pierre entra. Il portait une veste chaude et une écharpe. Derrière lui, elle aperçut une voiturette de golf portant le logo du vignoble, et elle comprit qu'il avait inspecté ses vignes. Les nerfs à vif, elle se rappela la prudence avec laquelle il lui fallait s'aventurer. Je suis tellement désolée pour Margot, ça a été un tel choc, dit-elle d'une voix vacillante. Pierre semblait préoccupé et n'était guère concentré sur elle, ce qui arrangeait bien Cassie. Oui, c'est une tragédie, dit-il en prenant un trousseau de clefs sur le plateau de la table du vestibule. Cassie força sa question à sortir d'une voix aiguë et grinçante de peur. Savez-vous pourquoi la police n'a procédé à aucune arrestation? L'enquête prendra un certain temps pour se conclure. Pierre la fixait maintenant droit dans les yeux, ses cheveux ébouriffés par la bise, ses traits creusés de rides profondes et sévères. Mais ce qui s'est passé est tout à fait clair, poursuivit il. Margot s'est suicidée. Il est donc peu probable qu'il y ait une quelconque arrestation. Cassie le dévisagea en retour, luttant pour ne pas montrer son incrédulité devant ces paroles. Margot s'est suicidée répéta t-elle. Tout ce à quoi elle pensait, c'était cette chute vertigineuse vers les dalles de marbre, loin, loin en dessous. Qu'aurait il fallu à Margot, à quiconque, pour grimper sur la rambarde du balcon et se lancer dans ce vide, sentir la poussée d'air glacial en plongeant, savoir que son corps serait écrasé et brisé par la chute? Cassie ne croyait pas cela possible, mais Pierre hocha distraitement la tête. Elle était déprimée, elle était instable. Tu as vu comment elle se comportait. Elle buvait beaucoup. Sa mort est assurément une catastrophe, mais la décision de mettre fin à sa vie était la sienne. Il regagna la porte d'entrée. Je sors maintenant, je reviendrai plus tard dans la soirée. Il y a à manger dans la cuisine, je crois. Sauras tu réchauffer la nourriture, servir le dîner aux enfants et les mettre au lit? Cassie acquiesça muettement, et Pierre sortit en fermant la porte derrière lui. Elle resta plantée dans le vestibule pendant quelques minutes, s'efforçant d'assimiler ce que Pierre avait dit. Un suicide? Margot? La haine et la méchanceté qu'elle affichait étaient elles le reflet de sa propre haine de soi? Cassie secoua vigoureusement la tête. Margot avait tout, c'était une princesse gâtée. Si elle était déprimée, elle aurait pu se payer tous les médicaments dont elle avait besoin, elle était certaine que le médecin de Pierre lui aurait prescrit sans hésitation tout ce qui était nécessaire. Et cette mort, pourquoi quelqu'un d'aussi vaniteux? Pourquoi pas une overdose de pilules ou s'ouvrir les veines dans la baignoire avec un rasoir? Pourquoi choisir ce sceau terrifiant dans les ténèbres? Les mains de Cassie transpiraient rien qu'en pensant à ce qu'il aurait fallu pour cela. Elle monta lentement à l'étage, décidant que Pierre devait mentir, parce qu'il n'y avait aucune possibilité pour que cette version soit vraie. Il l'avait inventée pour se protéger, et Cassie ne le croyait pas du tout. Les événements de la journée avaient pesé sur les enfants, qui étaient tous fatigués et boudeurs au dîner, et ne rechignèrent pas à se coucher de bonne heure. Émotionnellement à bout et épuisé, Cassie déballa ses affaires, qui avaient clairement été fouillées par la police, même si elles avaient été remises en place. Puis elle se mit au lit après avoir fermé sa porte à clef et s'être assurée qu'elle prenait bien la dose recommandée de ses médicaments, même si elle était tentée d'avaler un comprimé supplémentaire pour avoir un sommeil sans rêve. Une fois de plus, elle fut hantée par des cauchemars. Le premier rêve frappant fut celui de Jackie. Sa sœur lui faisait face, ses cheveux brillants flottant au vent. Dans le rêve, ils étaient d'un blond léger. Derrière elle se trouvait le ravin, plus profond et plus meurtrier que Cassie ne s'en souvenait. Ses parois abruptes tombaient dans un vide sans fond. Jackie s'accrochait à un tronc d'arbre tordu pendant qu'elle se moquait de Cassie. Tu n'es rien de mieux qu'une salope, bonne à rien. Tu mérites la vie misérable que tu as. J'en ai une meilleure. Et je me moque de toi, espèce de petite minable triste et pathétique. Cassie sentit ses lèvres se retrousser de rage. Elle se précipita sur Jackie et les railleries de sa sœur se transformèrent en cris. Ses longs ongles rouges s'agrippaient à l'arbre, griffant l'écorce, mais Cassie vit que ses racines étaient faibles et déplantées, et elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle poussa l'arbre rabougri et ratatiné de toutes ses forces, et Jackie hurla de terreur et battit des bras quand l'arbre bascula dans le ravin, l'emportant avec elle. Ses cris n'en finissaient plus, et Cassie réalisa qu'elle criait également. Ce n'est pas réel, ce n'est pas réel criait-elle. Et ses cris terrifiés l'arrachèrent du rêve et la ramenèrent dans la réalité réconfortante, de retour au château. Mais elle n'était pas au lit. Enveloppée dans sa robe de chambre, elle regardait de nouveau la lune. C'était un spectacle familier, comme elle s'en souvenait, exactement comme elle l'avait dit à la police. La lune était presque pleine, basse sur l'horizon. Sa lueur rougeâtre illuminait les nuages épars qui l'entouraient et les collines sombres en contrebas. La vue était hypnotique, effrayante et magnifique. Un vent froid soufflait sur elle, la nuit était glaciale. Cassie était certaine que c'était plus un souvenir qu'un rêve. Mais en regardant autour d'elle, elle se rendit compte qu'elle avait plongé dans un nouveau cauchemar, un cauchemar plus troublant et terrifiant que celui qu'elle avait quitté. La peur l'inonda parce qu'elle n'était pas dans la chambre d'Ella dans ce rêve. Pas du tout. Elle était partie ailleurs, peut-être en somnambule, mais encore une fois, Peut-être pas. Elle regardait la lune depuis le parapet en pierre ornée du balcon de pierre. Chapitre 23. L'inspecteur Granger prit la cafetière dans la kitchenette pour se resservir du café avant de retourner à son bureau compact. La climatisation vibrait sur son réglage le plus chaud. Tout le monde plaisantait que Granger devait être né avec le sang froid. Et les stores étaient juste assez ouverts pour lui donner une vue de la Marne. Il adorait cette vue, il aimait pouvoir regarder la nature de haut, voir des gens heureux vivre leur vie, même quand, comme aujourd'hui, il faisait gris et pluvieux. Il posa le café sur une table d'appoint, là où il ne risquait pas de le renverser, et se repencha sur les dossiers et papiers qui se trouvaient devant lui, couvrant sa nouvelle affaire la mort de Margot Fabron. Granger prit son stylo et débrancha son téléphone portable du chargeur. Quel soulagement d'avoir du réseau! Il avait trouvé étouffant de ne pas pouvoir appeler ni envoyer de messages pendant qu'il était au château. Certes, cela rendait l'affaire plus compliquée, car la localisation et la triangulation des téléphones portables, le moment de l'envoi et de la réception des messages, jouaient souvent un rôle important pour confirmer les alibis. Cette commodité aurait certainement été utile ici. Pierre Dubois avait dit à la police qu'il gardait son portable personnel dans son bureau à Champigny-sur-Marne, faute de réseau à la maison. Il ignorait où était le téléphone de Margot, mais il avait dit qu'elle l'utilisait rarement pour la même raison. Granger avait demandé à Pierre de lui remettre son téléphone et avait requis un journal d'appel à partir de celui de Margot, ainsi que de la ligne fixe qui semblait être le seul moyen de communication du château avec le monde extérieur. En attendant, il relut ses notes d'interrogatoire. M. Dubois affirmait qu'il avait quitté le château peu après vingt-et-une heures trente la veille au soir. Il avait déclaré que Margot Fabron était saoule et belliqueuse, et qu'il n'avait pas voulu s'engager dans une dispute. Il avait dit à Margot qu'il passerait la nuit au chalet, un luxueux petit chalet situé près des vignobles du domaine qui servait de temps en temps d'hébergement aux journalistes de passage. Pierre avait dit qu'il serait de retour dans la matinée et qu'il pourrait discuter quand elle se serait calmée et aurait désoulé. En réalité, Pierre ne s'était pas rendu au chalet, mais était plutôt parti rendre visite à sa maîtresse, une jeune femme divorcée qui vivait à Valenton. C'est là qu'il avait passé la nuit. Sa maison avait des caméras de sécurité et lorsque la police était venue hier après-midi, elle avait confirmé l'histoire et avait même fourni des enregistrements vidéo horodatés. Montrant la voiture de Pierre arrivant au portail à vingt-deux heures quinze et partant le lendemain matin à six heures trente. L'autopsie aurait lieu dans la journée et Granger espérait que le rapport, ou du moins les premières conclusions, soient disponibles en fin d'après-midi. Il ignorait avec quelle précision l'heure de la mort pouvait être confirmée. Cela pourrait changer la donne ou ne pas être concluant du tout. Le statut d'homme d'affaires réputé de Pierre n'arrangeait pas les choses. Malgré le fait qu'il soit un adultère et un menteur, l'homme avait du pouvoir, du prestige et de l'influence dans la région. Cela signifiait que la police devait faire preuve de prudence. Une arrestation injustifiée serait une catastrophe. La famille de Margot, par contre, n'était pas d'ici. Ses parents étaient divorcés, sa mère vivait en Normandie et son père en Occitanie, dans le sud de la France. Ils avaient été choqués d'apprendre la mort de leur fille, mais aucun d'eux n'était resté proche d'elle depuis qu'elle avait quitté le domicile familial, et Margot était fille unique. Étonnamment, Granger avait l'impression que la famille de Margot n'était pas riche. Sa mère avait dit à Granger que Margot avait travaillé comme mannequin à Paris jusqu'à ses vingt-deux ans, et qu'elle avait rencontré Pierre dans le cadre de son travail. Elle avait abandonné le métier de mannequin et avait dirigé l'une de ses galeries d'art pendant quelques années. Avant de s'installer chez lui après le décès de l'épouse de Pierre l'année dernière, Granger était convaincu que leur relation avait probablement commencé beaucoup plus tôt, vraisemblablement à l'époque du changement de carrière de Margot. Ses pensées furent interrompues par un coup à sa porte. Bisset entra en portant une liasse de notes qu'elle posa sur le bureau. Elle regarda autour d'elle, puis, d'une manière éloquente, s'arrêta sur le cadran du climatiseur. Il fait très chaud ici. Observa-t-elle. Granger haussa les épaules en guise d'excuse. Je n'aime pas le froid. Baisse la température si tu veux. Je pense que je peux survivre ici quelques minutes. Bisset prit une chaise et s'assit en face de lui. Les vérifications des antécédents de la fille au père sont confirmées, déclara-t-elle. Cassival a bien été engagé par l'agence, comme elle l'a dit. Pas de condamnation intérieure, pas de casier judiciaire. Granger secoua la tête. C'est un témoin épouvantable. Il est difficile de la croire, quoi qu'elle dise. Son histoire change comme le vent. Il bougea la main pour illustrer. Bisset acquiesça. Sa description de la lune paraît précise pourtant, dit elle. J'ai vérifié les heures. Les chambres de ce côté de la maison sont orientées vers le sud ouest, donc elle aurait vu la lune se coucher et aurait ouvert la fenêtre de la chambre d'Ella entre vingt et une trente et vingt deux heures. Granger fronça les sourcils. J'espère qu'on n'aura pas à la mettre à la barre des témoins. Je suis sûr qu'elle nous surprendrait tous avec de nouvelles informations. Très probablement, elle se surprendrait elle-même. Je suis d'accord, confirma Bisset. Et le témoignage d'un enfant de cinq ans ne tiendra devant aucun tribunal. Mais si la mort de Margot est un suicide, comme le prétend Pierre Dubois, cela l'innocenterait. Si tel était le cas. Granger souligna le mot si. Margot et Pierre vivaient ensemble depuis un an et étaient sûrement amants depuis bien plus longtemps que ça. Elle arrive et soudain il y a un décès. Oui, le timing est une coïncidence. Je me posais aussi la question. Bisset consulta attentivement ses notes. Continue. Granger prit son café. C'est une jolie fille, la fille au père, je veux dire. Et M. Dubois est, selon ses dires, un homme infidèle. La relation avec sa fiancée était houleuse. Puis une nouvelle personne arrive. Lui et Cassie auraient-ils pu être complices du meurtre de Margot Fabron? C'est une possibilité, opina Granger. Mais elle n'est là que depuis trois jours. À quel point peut-on avoir une idylle fulgurante en trois jours? Des célébrités se sont rencontrées, se sont mariées et ont divorcé en moins de temps que ça, sourit Bisset. C'est vrai, donc on n'exclut pas cette possibilité. Mais j'ai la ferme conviction qu'il y a autre chose, que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Il nous manque certains faits on devrait en savoir plus après le rapport du légiste dit bisset il vient de m'envoyer un e mail pour me dire qu'il sera prêt dans les prochaines heures elle regarda par la fenêtre admirant la vue regarde il s'arrête de pleuvoir je crois que je vais prendre une pause et aller faire un tour au bord de la rivière pour me rafraîchir granger à sa grande surprise se trouva en train de rire avec elle tu devrais être heureuse d'avoir la chance de faire ça aujourd'hui Dès la remise du rapport, Granger et Bisset se réunirent de nouveau. Cette fois-ci, comme la réunion allait durer plus longtemps, Granger apporta ses dossiers dans la salle de conférence. Ici, il y avait plus d'espace, ce qui lui plaisait, et la climatisation était réglée quelques degrés plus bas, ce qui satisfaisait Bisset. Granger imprima deux exemplaires du rapport, contrôlant la vague d'excitation qu'il ressentait toujours dans l'espoir que le cadavre lui-même révélerait les secrets que les vivants cachaient. Il se rappela sévèrement de ne pas avoir la moindre attente, de ne pas faire de suppositions, simplement d'interpréter ce que disaient les preuves. Il remit une copie à Bisset et pendant quelques minutes, ils lurent attentivement. Il y a des détails intéressants là-dedans. conclut finalement Granger. La révélation la plus importante et la plus choquante, celle qui lui sauta aux yeux, fut le fait que Margot Fabron avait des marques de strangulation fraîches sur son cou ne datant pas de plus de deux jours. Les échymoses étaient significatives, selon le médecin légiste, et sa gorge était encore légèrement enflée. C'était une preuve irréfutable que sa relation avec Pierre Dubois n'avait été ni normale ni heureuse, et ce détail provoqua chez Granger une flambée d'excitation. De plus, son taux d'alcoolémie était juste en dessous de 0,20. Au moment du décès, elle était en grave état d'ébriété, et de plus, le rapport indiquait la présence d'antidépresseurs et de somnifères dans son système sanguin. L'étranglement est un détail important, releva Bisset. Mais c'est regrettable que l'heure de la mort ne puisse être calculée plus précisément. Granger hocha la tête. C'était la plus grande déception du rapport. Le médecin légiste avait déclaré que, d'après la température de son corps, Madame Fabron était décédée entre vingt-deux heures et minuit. Comme Granger s'y attendait, il était impossible de dire, d'après l'angle de la chute, si elle avait effectivement sauté ou si elle avait été poussée. La chaise renversée que la fille au père avait mentionnée pourrait indiquer une lutte, ou simplement signifier que Fabron l'avait utilisée pour monter sur le parapet et l'avait renversée dans la foulée. Alors, quelle est notre prochaine étape demanda Bisset. Dragueur en série, tendance violente, répondit Granger. On va enquêter plus en détail sur les antécédents de Pierre Dubois. Renseigne-toi sur ses partenaires et liaisons précédentes. Ça ne peut pas être sa première ou sa seule maîtresse. Où sont les autres Que peuvent-elles nous dire De plus, Dubois a déclaré que sa femme est décédée il y a un an dans un accident de voiture. Rassemblons les détails à ce sujet. Bisset hocha la tête. Un autre article pour la liste, reprit-elle. Pierre a dit qu'il était allé chercher Margot chez le coiffeur plus tôt dans la journée. J'aimerais savoir qui est cette personne et lui parler. Les femmes parlent à leur coiffeur et révèlent souvent des détails personnels. S'il se passait quelque chose dans la vie de Margot, des conflits personnels ou des situations qui la mettaient mal à l'aise, le coiffeur pourrait être en mesure de nous en dire plus. D'autant plus que cette visite a eu lieu peu avant sa mort. Bonne idée. Tu prends contact avec le coiffeur alors? Granger referma le dossier, frustré que l'épreuve ne soit pas concluante, mais espérant qu'ils avaient de nouvelles pistes à explorer. Il venait lui même de parents pauvres qui s'étaient battus pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Il savait ce que c'était que d'avoir à se démener pour devenir quelqu'un, et quel énorme handicap la pauvreté pouvait représenter. Il avait vu l'avantage que conférait une famille fortunée et à quel point cela vous plaçait devant la meute. Pour cette raison, Granger avait une aversion innée pour Pierre. Il sentait en lui de l'arrogance et la conviction qu'il était au-dessus de la loi. Pierre savait qu'il détenait toutes les cartes et qu'il s'en servirait à sa guise pour garantir une atteinte minimale à sa personne ou sa réputation. Malgré tout, Granger savait qu'il devait séparer l'émotion de la logique. Si c'était un acte criminel, la fille au père nerveuse, avec son histoire vacillante et son alibi peu convaincant, était beaucoup plus susceptible d'être impliquée. Après tout, Pierre n'était pas le seul homme à s'adonner à des aventures, et sa bonne réputation dans la région avait été acquise au fil des ans. Peut-être que Bisset avait raison, et que les deux avaient conspiré ensemble. Sinon, la jalousie aurait pu jouer un rôle. Margot n'était pas beaucoup plus âgée que Cassie, après avoir vu ce que l'autre femme avait, à la suite d'une lutte acharnée entre elles, il aurait pu pousser Cassie à commettre un crime passionnel. Granger soupira. Il devrait mettre de côté ses propres préjugés personnels contre Pierre, suivre le protocole, interroger les témoins et laisser les preuves parler d'elles-mêmes. Même si Pierre avait toutes les cartes en main, Granger soupçonnait que la fille au père instable finirait probablement par être le joker dans le paquet. Chapitre 24. Cassie remuait sur le banc dur et froid, inconfortable de l'église. Ella était assise sur sa gauche, pétrifiée, tandis que Marc bougeait sans arrêt sur sa droite. Malgré le temps froid et pluvieux, près d'une centaine de personnes s'étaient rassemblées dans la chapelle historique pour les obsèques de Margot. L'intérieur était sujet au courant d'air et les chauffages au gaz, placés un peu partout, ne contribuaient guère à dissiper le froid. En observant les anciens murs de pierre de la chapelle, imprégnés de l'odeur de l'encens, et les vitraux subtilement travaillés, Cassie supposa qu'elle avait des siècles d'existence, qu'elle avait vu des milliers d'événements semblables par le passé. Cassie n'aurait jamais imaginé que moins d'une semaine après son arrivée en France, elle assisterait aux funérailles d'un membre de sa famille d'accueil, et encore moins que le décès aurait lieu dans des circonstances aussi suspectes. Pierre, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, les cheveux impeccables, était assis au premier rang, entouré des parents de Margot. Sa tête était inclinée. De temps en temps, il prenait un mouchoir blanc immaculé dans sa poche et se tamponnait les yeux. Il jouait à la perfection le rôle du fiancé en deuil, et même si sa performance était spectaculaire, Cassie n'y croyait pas du tout. Pourquoi personne d'autre ne le suspectait? L'opinion unanime semblait être que la mort de Margot était un suicide. Même le prêtre, dans son sermon, fit référence à l'acte tragique que Margot avait commis, et comment notre Dieu qui pardonne tout l'accueillerait et l'absoudrait de toute façon. Et si quelqu'un d'autre était à blâmer pensa Cassie, scrutant farouchement le prêtre comme si son regard pouvait le forcer à reconnaître qu'il y avait une autre raison au décès de Margot. Alors que la messe touchait à sa fin, le curé invita l'assemblée à l'accompagner au cimetière voisin, où les cendres de Margot reposeraient en paix. Essayant de tenir à la fois un parapluie démesuré et deux enfants, l'un d'eux voulait faire des tours de piste dans les allées gravillonnées du cimetière, et l'autre à la traîne se plaignait de la pluie, Cassie n'eut pas l'occasion de remarquer grand-chose jusqu'à ce qu'ils aient atteint la tombe en balayant la foule du regard, elle aperçut Marny et quelques autres membres du personnel du château, et elle remarqua avec surprise que Bisset était également présente, portant une robe noire et un élégant manteau gris. Bien qu'elle se tienne immobile et la tête baissée, Cassie remarqua que les yeux de l'inspectrice étaient vigilants et constamment en mouvement. Cela la rassura de savoir qu'elle n'était pas la seule à avoir des soupçons sur la mort de Margot. La police aussi était là pour observer du moins l'espérait elle. Réalisant que Bisset la fixait droit dans les yeux, Cassie détourna rapidement son regard. Nous confions donc son corps à la terre, déclara le curé d'une voix forte, ramenant Cassie sur la cérémonie. De la terre à la terre, des cendres aux cendres, de la poussière à la poussière. Alors que résonnait l'irrévocabilité de ces paroles, Cassie entendit des pleurs et des sanglots tout autour d'elle. Pierre enlaça la mère de Margot, tête penchée, épaules tremblantes. Le père de Margot cacha son visage dans ses mains. Elle, après un regard étonné sur ceux qui pleuraient, éclata bruyamment en sanglots, et même Marc resta tranquille, sentant la solennité de l'instant. Cassie remarqua de l'autre côté de la tombe, à travers la bruine, qu'une seule personne n'était pas affectée par l'émotion du moment, et ses soupçons s'éveillèrent à nouveau, cette fois dans une autre direction. Antoinette, la tête haute, les yeux secs et son béret bleu foncé arrangé sous un angle effronté, regardait l'urne s'abaisser avec un petit sourire mystérieux. Cassie retourna au château au milieu d'un cortège de voitures. Elle n'avait pas réalisé qu'il y aurait autant de monde à la veillée funèbre. Il semblait que tous ceux qui avaient assisté aux funérailles venaient boire et manger. On peut aller jouer dans le verger? demanda Marc alors qu'elle garait la Peugeot. Non, pas encore, répondit Cassie d'un ton ferme. Les élégantes chaussures noires de Marc étaient déjà couvertes de boue à cause du trajet dans le cimetière. Malgré tous ses efforts, il s'était écarté de l'allée principale. Elle ne pouvait qu'imaginer les bêtises qu'il allait commettre en quelques minutes sans surveillance, en faisant le malin devant les invités. Bien sûr, dès qu'elle déverrouilla la voiture, il se rua dehors, et Cassie fut forcée de le traquer dans le verger boueux et couvert de feuilles. Le temps qu'elle le rattrape, le chope et retourne chercher Ella, ses bottes étaient également maculées de boue et elle avait accroché sa veste en daim noir à une branche et l'avait déchirée. Cassie hésita devant la porte d'entrée, assimilant la foule de personnes en deuil à l'intérieur. Un violoniste vêtu de noir jouait dans le vestibule et le salon et la salle à manger formelle avaient été ouverts. Un feu brûlait dans la cheminée, et la longue table de la salle à manger était jonchée de plats de toutes sortes. Des verres en cristal étaient placés sur le buffet, ainsi qu'une sélection de vins, de xérès, de bière et de cognac. Cassie resserra sa prise sur le bras de Marc, sachant qu'elle ne pouvait pas le laisser seul un instant avec tant d'objets cassables en évidence. Comme de plus en plus de gens arrivaient, Cassie vit son niveau de stress augmenter. Antoinette, toujours glaciale, était assise sur un pouf ottoman à siroter un petit verre de xérès pour lequel Cassie espérait qu'elle avait permission, car elle ne lui en avait pas donné. Ella et Marc demandèrent chacun deux assiettes de nourriture, ce qui les occupa pendant un moment mais quand l'attrait de la table s'estompa, ils commencèrent à s'ennuyer et à devenir ingérables. Il fut impossible à Cassie de tenir Marc, de réconforter Ella et d'interagir poliment avec les autres invités. De plus, elle était affamée et n'avait pas eu l'occasion de manger quoi que ce soit. Elle se sentait piégée dans son rôle et tout à coup, elle eut une envie folle de sortir de cet espace claustrophobique. Vous êtes la fille au père Une autre personne en noir la saluait juste après qu'elle eut installé Ella sur le pouf à côté d'Antoinette. Oui. Cassie se força à sourire poliment. Quelle tragédie Saviez-vous que Margot était si déprimée Cassie présuma que cette femme, comme beaucoup d'autres, devait avoir un lien avec Pierre. Elle portait un collier de perles et des boucles d'oreilles en diamant, et une étole de fourrure drapée sur ses épaules. Par contre, Cassie avait remarqué que les parents de Margot étaient habillés plus simplement, et que sa mère ne semblait porter aucun bijou. Je n'étais là que depuis trois jours quand c'est arrivé. Expliqua Cassie, essayant de maintenir un contact visuel tout en agrippant Marc, car ce dernier, qui avait refusé de s'asseoir avec les autres, en profitait pour s'échapper vers la liberté. Ah, vous êtes arrivé si récemment Oui, je suis encore en train de m'installer et de trouver mes marques. Ça a été un choc terrible. Et bien sûr, ça a été stressant pour les enfants. Le sourire de Cassie s'était transformé en rictus. Percevant sa distraction, Marc se libéra d'une torsion du bras et disparut dans la foule. Oui, les pauvres, je me souviens que c'est à la même époque l'année dernière que leur mère est décédée mais je n'ai pas pu assister à ses funérailles car j'étais à l'étranger. Vous savez, sa voiture s'est écrasée tard en pleine nuit sur la route nationale en direction de Guigne. Baissant la voix, la femme précisa. La voiture a quitté la route, a fait plusieurs tonneaux et a pris feu. Je ne crois pas qu'ils aient jamais découvert la cause de l'accident. Quelle année tragique pour Pierre! Personne ne devrait subir autant de pertes en si peu de temps. Si vous voulez bien m'excuser, je dois juste garder un œil sur Marc, dit Cassie avant de s'éloigner. Où était passé le garçon? Sa première recherche fut la salle à manger, mais heureusement, il n'était pas là. Elle en profita pour prendre trois petits pains aux saucisses, les fourrant dans sa bouche et se tournant vers le mur pour qu'elle puisse mâcher et avaler rapidement sans que personne ne lui parle. Marc avait dû aller dehors pour brûler son énergie après avoir mangé tous ses gâteaux, tartes et pâtisseries. Cassie se fraya un chemin dans le salon et fit un détour par la gauche, juste au cas où il se serait rendu dans la salle de musique. Heureusement, il n'y était pas et la pièce était vide. Cassie ferma la porte et s'effondra sur le tabouret du piano, incapable de supporter la foule pour le moment. La femme aux bijoux à qui elle venait de parler avait lâché une autre bombe. Cassie trouvait très troublant que la femme de Pierre soit morte dans des circonstances aussi mystérieuses. Où allait-elle, tard le soir Qu'est-ce qui avait pu provoquer une telle perte de contrôle de la voiture Ça avait l'air d'un accident impliquant un seul véhicule. Et maintenant, une autre mort tragique était survenue. Pourquoi personne n'avait le moindre doute voulait hurler Cassie. Elle enfouit sa tête dans ses bras, souhaitant être n'importe où ailleurs qu'ici. Dans l'obscurité, elle revécut la dispute qu'elle avait eue avec Margot. Comment elle l'avait repoussée en s'écartant de ses talons aiguilles mortels Comment les insultes hurlées par Margot l'avaient agressée, transperçant son âme ?« Salope Pute !» Elle avait détesté Margot pour sa méchanceté, sa prétention, son manque total d'empathie ou même de reconnaissance de Cassie en tant qu'être humain. Comment as tu pu devenir si agressivement égocentrique, croire que tu étais meilleur que les autres et que tu pouvais les traiter comme tu voulais? Une chose était sûre, même si l'on n'est pas censé dire du mal des morts, Cassie estimait qu'elle avait mérité ce qui lui était arrivé. Elle se rappela comment elle avait regardé par dessus le parapet, et vu Margot disparaître dans les ténèbres, les membres battant l'air sous la lumière froide de cette lune sereine. Non cria Cassie à voix haute. Elle ouvrit grand les yeux, respira profondément, fixa le tapis richement orné de motifs. Ça n'était pas arrivé, ça n'était jamais arrivé. C'était son propre fantasme mêlé au cauchemar qu'elle faisait sur Jackie et la vue de la lune depuis la chambre d'Ella. Elle n'avait vraiment pas fait ça, elle n'aurait pas pu. Est-ce que ça va? Cassie sursauta, découvrant que Pierre était entré dans la pièce et qu'il fermait la porte derrière lui. Il avait dû l'entendre crier. Il ne saurait jamais à quoi elle pensait. Elle s'empressa de se lever. Oui, ça va. Je suis désolée. J'ai été avec les enfants tout le temps, mais Marc est sorti et je prenais juste une minute pour rassembler mes esprits avant de le chercher. Cette journée a été si émouvante. Elle voulut partir, mais il l'arrêta, la main pesant sur son épaule. En effet, ça a été un moment émouvant. Pour moi, pire que tout. Je me sens si seule qu'assis. Dans des moments comme celui-ci, on réalise à quel point on est vulnérable, à quel point la vie est fragile. Viens ici, serre-moi dans tes bras. Réconfortons-nous un instant. La dernière chose qu'elle voulait, c'était un réconfort mutuel de la part de Pierre. L'idée lui donna la chair de poule, mais comme un refus à ce moment-là serait cruel, elle l'enlaça à contre-coeur. Il la serra contre lui tandis que ses bras s'enroulaient autour de sa taille. Sa joue était écrasée contre le revers en laine parfaitement piqué du costume de pierre. Ah, Cassie, tu es si jeune, si belle, si vivante. Je crois que tu ne connais pas ta propre beauté. Elle réalisa trop tard qu'elle était bloquée dans son emprise. Sa respiration avait changé, était devenue rauque. Ses mains erraient vers le bas, vers sa taille, ses hanches. Il l'attira contre lui, attrapa ses fesses de la main droite, les pétrit et les palpa pendant que sa main gauche la collait à lui. Il baissa la tête contre la sienne, son haleine lui chatouillant l'oreille. Nous allons nous consoler mutuellement. Pas ce soir, j'ai d'autres obligations, car certains invités restent pour la nuit. Mais bientôt je viendrai dans ta chambre, ou peut-être je t'amènerai dans la mienne, pour que les enfants ne nous entendent pas. Je sais que tu es aux petits soins pour eux. Mais tu ne peux pas penser à leur faire plaisir toute la journée et toute la nuit. Tu dois également penser à ton employeur, n'est-ce pas Tu dois faire plaisir à l'homme qui t'a donné ce travail. Non cria Cassie, mais son visage était enfoui dans la laine étouffante et sa voix assourdie. Sous le choc de ce qui se passait, Cassie se demanda si elle ne devait pas serrer les dents et endurer l'expérience, aussi violente soit-elle. Avec tant de gens à côté, ce ne pouvait être qu'un pelotage un peu poussé, et il ne tarderait pas à s'arrêter. Mais elle réalisa alors qu'il s'agissait de Pierre, sa maison, ses règles. Il arrêterait quand il en aurait envie, voire pas du tout. Pire encore, chaque moment qu'elle passerait dans ses bras serait considéré comme un consentement passif, lui donnant le droit de continuer. Non. Cria t-elle plus fort cette fois, et il l'entendit, mais il ne s'arrêta pas. Elle essaya de le repousser, mais son bras se serra comme un étau autour d'elle. Tandis qu'elle se débattait sous son emprise, il trouva l'interstice entre sa jupe et son haut, et sa main glissa à l'intérieur, sous ses vêtements, sous sa culotte. Ses doigts s'écartèrent, chauds contre sa chair nue. Cassie fut submergée par la panique. Elle n'avait pas consenti à cela, pas du tout, pas le moins du monde, et elle n'allait pas laisser Pierre se leurrer en se l'imaginant. De toute façon, c'était l'enterrement de sa fiancée, bon sang. Pourrait il y avoir un moment plus inapproprié pour qu'il lui force la main? L'indignation provoquée par cette pensée donna à Cassie le courage d'agir. Elle se tordit sur la droite, juste assez pour saisir le seul objet qu'elle avait vu du coin de l'œil. C'était l'une des vieilles encyclopédies qui se trouvait sur une étagère à côté du piano. Elle souleva le livre et frappa Pierre à la tête aussi fort qu'elle le put. Le gros volume le frappa à la tempe gauche. Ce n'était qu'un coup oblique, mais douloureux et inattendu, suffisant pour qu'il la relâche. L'adrénaline lui donna des ailes pour se dégager, s'esquiver et gagner la porte. Elle l'ouvrit à la volée et entendit son cri de rage alors qu'elle s'échappait, n'osant pas regarder en arrière, mais sachant que ses traits seraient plissés en un froncement de sourcils orageux dans une colère noire. Elle se retrouva dehors, le cœur battant, les cheveux en désordre, son chemisier sorti de sa jupe et son bouton du haut manquant. Mais elle lui avait échappé et elle était de retour en sécurité dans la foule. Totalement secouée par ce qui venait de se passer, Cassie décida d'abandonner sa recherche de Marc. Elle avait besoin d'aller dans sa chambre, de s'arranger et de faire de son mieux pour retrouver assez de calme pour survivre à cet après-midi sans fin. Même si elle avait envie de s'allonger sur son lit et de pleurer hystériquement devant l'atroce agression de Pierre. Mais alors qu'elle prenait cette direction, elle vit Bisset debout au pied de l'escalier. En s'approchant, elle remarqua que l'inspectrice la regardait d'un air curieux. Cassie fit aussitôt demi-tour et sortit, craignant que son apparence désordonnée ne rende Bisset soupçonneuse. Si on lui posait des questions, ce ne serait que sa parole contre celle de Pierre. La police finirait par partir et elle serait seule face à la fureur de Pierre. Les conséquences pour elle seraient impensables. Glacée jusqu'au cœur, Cassie réalisa que les conséquences étaient déjà là. Pierre avait dit qu'il y avait des invités au chalet ce soir, mais qu'il partirait demain. Elle savait que Pierre ne se découragerait pas. Elle s'était offert quelques jours de sursis tout au plus. Il s'en prendrait à elle de nouveau, plus énervé que jamais, plus déterminé que jamais et paré à tout ce qu'elle pourrait faire. Personne ne pouvait la protéger de cela, et sans son passeport, elle était prisonnière ici. Soudain, Cassie se demanda si Margot aussi avait été prisonnière dans sa vie apparemment parfaite, et si sa mort avait été la punition pour avoir tenté de s'échapper. Chapitre 25 Cassie dormit à peine cette nuit-là. Son esprit bourdonnait d'idées tandis qu'elle cherchait des moyens pratiques d'échapper à sa situation. Elle avait songé à de nombreux plans pour s'évader, ainsi qu'à des moyens de se protéger pendant qu'elle était au château, mais aucun d'eux n'était pratique, voire réalisable. Vers la fin de cette nuit interminable, elle s'assoupit enfin et se mit à rêver. Ayant grand besoin d'un dénouement heureux, son subconscient imagina une solution brillante à ses problèmes, un processus logique Étape par étape, qu'elle pourrait suivre pour se protéger de Pierre, récupérer son passeport et partir. Au réveil, le rêve se dissipa, tout comme l'impression de soulagement incroyable qu'il avait rempli, sachant que tout se passerait bien. Il n'y avait pas de solution. Son moment de réconfort lui fut arraché par la lumière froide du matin, la laissant seule et vulnérable. Cassie gagna la salle de bain et prit une longue douche bien chaude. L'eau qui coulait était apaisante, ce qui l'aida à donner un coup de fouet à son cerveau. Elle décida que sa prochaine étape serait d'appeler l'agence au père et d'expliquer toute la situation à Maurine. Elle saurait comment gérer cela. Elle pourrait lui donner des conseils sur ce qu'il faut faire, et au moins quelqu'un d'autre serait au courant de la situation difficile dans laquelle elle se trouvait, parce qu'en ce moment elle était complètement seule. De retour dans sa chambre, elle alla jusqu'à la prise où son téléphone portable était en train de charger. Il n'était pas là. Cassie regarda là où elle était sûre qu'il se trouvait. Le câble traînait par terre, et elle fronça les sourcils, consternée, lorsqu'elle se rendit compte que son téléphone n'était pas du tout dans la chambre. Quand l'avait elle vue pour la dernière fois? Cassie essaya de repenser à l'ensemble de la journée chaotique de la veille elle avait voulu prendre le téléphone avec elle à l'église, juste au cas où elle pourrait y capter un réseau. Elle l'avait pris, puis s'était dit, à juste titre, qu'elle n'aurait pas le temps de se libérer pendant les funérailles. Quand bien même elle avait envisagé de le prendre, maintenant elle ne se rappelait plus si elle l'avait fait. Si ce téléphone avait atterri dans la poche de sa veste, il y avait de fortes chances qu'elle l'ait laissé tomber quelque part ou qu'il ait glissé, et la liste d'endroits où cela aurait pu arriver était très longue à l'église, quelque part dans le cimetière, sur le parking, pendant qu'elle ramenait dans la voiture un marc réticent. Il avait pu tomber en le poursuivant dans le verger ou même dans la salle de musique. Cassie se mordit la lèvre en se remémorant ce qui s'était passé dans cette pièce la veille. Elle n'aurait pas remarqué la perte de son téléphone alors qu'elle essayait d'échapper aux avances de Pierre, et s'il l'avait ramassé, il était peu probable qu'il le rende après ce qui s'était passé. Elle avait laissé la porte de sa chambre ouverte pendant qu'elle prenait sa douche, et aussi la veille au soir pendant que les enfants dînaient. Donc, quelqu'un avait pu le prendre. Cassie décida qu'elle n'allait même pas s'engager dans cette voie. C'était beaucoup plus probable qu'il soit tombé. Dans ce cas, elle avait perdu tous ses contacts, tous ses messages téléchargés et tous ses emails. Elle n'avait même pas noté sur un papier le numéro de l'agence. Email, appel, message, capture d'écran du contrat. Tout était dans son portable. Elle n'était pas sûre qu'il soit possible d'obtenir une nouvelle carte SIM ici en France. C'était un désastre total. Son seul moyen de communication avec le monde extérieur, avec les gens qui la connaissaient, avait disparu. Cassie se détourna de la vue déprimante du chargeur vide, en quête désespérée d'un nouveau plan, mais incapable d'y réfléchir. Alors qu'elle emmenait les enfants prendre le petit déjeuner, Cassie se rappela distraitement l'optimisme joyeux qu'elle avait eu en s'inscrivant à l'Agence, croyant arriver dans une maison normale avec des gens ordinaires et aimables. Au lieu de cela, elle était coincée dans une situation infernale qui devenait d'heure en heure plus incontrôlable. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait à Pierre au petit déjeuner. Elle supposa qu'elle devait agir comme si de rien n'était, car c'était les règles du jeu grotesque qui l'avaient forcée à jouer. Elle pouvait sortir du jeu et l'affronter, mais elle savait à quel point ce serait risqué. Et si elle le faisait devant les enfants, ce serait blessant et cruel pour eux. Les tables qui avaient été disposées pour les funérailles avaient été rangées, mais les grandes photos encadrées de Margot étaient encore exposées sur la table du vestibule. Il y en avait trois. Un portrait, une photo en pied d'elle en robe du soir, et un cliché d'elle et Pierre devant le château. Celle de Margot et Pierre avaient l'air d'avoir été prises lors de prises de vue officielles, et Cassie se dit que les deux autres devaient être des photos de studio, car Margot avait l'air de poser pour les vêtements et les bijoux qu'elle portait. Cassie l'avait remarqué quand elle les avait vues pour la première fois, et cela lui sauta de nouveau aux yeux. Margot ne souriait sur aucune des photos. À son grand soulagement, Pierre ne se montra pas au petit déjeuner, et quand Marnie apporta du café et du jus d'orange, elle confirma qu'il avait d'autres projets. C'est une belle journée. Monsieur Dubois fera donc visiter le domaine et la cave à ses invités à huit heures, et nous leur préparons le petit déjeuner à neuf heures, dans la véranda qui surplombe les vignobles, expliqua t-elle en souriant chaleureusement à Cassie, comme si elle devinait que l'absence de Pierre était de bon augure. Les invités passeront ils une autre nuit ici? Cassie espérait qu'elle serait en sécurité plus longtemps, mais elle frissonna de peur quand Marnie secoua la tête. Ils partiront après le petit déjeuner, dit elle. Y a t-il quelque chose que les enfants ou moi devons faire aujourd'hui? demanda Cassie. Les vacances sont maintenant terminées et l'école va reprendre lundi. Pourrais tu vérifier que les cartables des enfants sont prêts et qu'ils ont tous les cahiers et les manuels scolaires nécessaires? Tout ce dont ils ont besoin, tu pourras l'acheter en ville demain. D'accord, opina Cassie. Elle se versa une tasse de café, réalisant que ses mains tremblaient et espérant que les enfants ne le remarqueraient pas. Ella était occupée à étaler du Nutella sur son toast, et Marc picorait toutes les fraises dans le bol de fruits, mais Antoinette parut sentir son inquiétude. Dès que Marnie eut quitté la pièce, elle entama une conversation de sa voix mielleuse dont Cassie avait appris à se méfier. Es tu allée à l'enterrement de ta sœur, Cassie? Cassie renversa un peu de la crème qu'elle se versait. Elle éclaboussa la soucoupe bleue et la nappe, et elle attrapa une serviette en vitesse. De quoi tu parles Ma sœur n'a pas eu d'enterrement Le souvenir de son rêve ressurgit. Les paroles moqueuses de Jackie, et la façon dont elle avait mentalement poussé Cassie à bout, de sorte qu'à son tour, Cassie l'avait physiquement poussé dans le ravin. Elle aurait aimé pouvoir parler à quelqu'un de ce rêve, et découvrir ce qu'il signifie. Quelle peur elle devait affronter et qu'au moins elle pouvait les surmonter. Elle était sûre qu'un thérapeute pourrait l'aider, mais elle ne connaissait personne dans le coin. Après ce qui était arrivé à Margot, elle ne ferait que s'incriminer en le racontant. Ils ne l'ont pas enterrée s'étonna Antoinette, délibérément choquée. Elle n'est pas morte, dit Cassie prudemment, inquiète de la tournure que cela prenait. Tu m'as dit qu'elle était morte? Riposta Antoinette sur un ton plus pragmatique que railleur. Je n'ai jamais rien dit de tel. Cassie entendit le ton défensif de sa propre voix. Mais si tu l'as dit, quand on parlait dans la voiture en allant à l'enterrement hier. Elle ne l'a pas dit, Marc Antoinette regarda Marc de l'autre côté de la table qui avait fini les fraises et piochait maintenant des quartiers de mandarines. T'as dit que ta sœur était perdue dans les bois dit Marc d'une voix forte. Cassie se figea pendant qu'Antoinette hochait vigoureusement la tête. Oui, c'est ce que tu as dit. Elle était perdue dans les bois, et tu craignais qu'elle soit morte. Cassie se sentit malade. Elle reposa sa tasse sans boire une goutte de café. Il ne serait sûrement pas possible aux deux enfants de confirmer une histoire complètement fictive. De plus, leur mention des bois était profondément troublante, parce qu'elle faisait partie de ce rêve terrible. Elle n'avait jamais eu l'intention de divulguer ces détails à aucun membre de la famille, jamais. Maintenant, les enfants lui disaient qu'elle l'avait fait. Ayant du mal à prendre du recul sur la situation, Cassie supposa qu'il était possible que Marc se souvienne du moment où Ella s'était perdue dans les bois. Il pensait peut-être à sa propre sœur et non à celle de Cassie et jouait simplement le jeu avec Antoinette. Elle était nerveuse en allant à l'enterrement. Elle s'était sentie stressée et perturbée. Dans la voiture, elle avait bavardé sans vraiment penser à ce qu'elle disait, préoccupée par la nécessité de trouver l'église et d'y amener tout le monde à temps. Elle avait répondu aux questions indiscrètes d'Antoinette, ce qui la mettait toujours sur la défensive, tout en essayant de garder un œil sur le siège arrière où Marc avait défait sa ceinture de sécurité et avait passé sa tête par la vitre. Donc, étant donné la quantité de distractions auxquelles elle avait dû faire face, il était possible qu'elle ait dit quelque chose, surtout que les deux enfants en étaient certains. Cassie eut envie de pleurer. Elle ne pouvait plus se faire confiance. Les trous dans sa mémoire la terrifiaient. Elle aurait pu facilement dire quelque chose aux enfants qui l'auraient impliquée, et l'avait peut-être fait. Si elle avait mentionné les bois, elle aurait pu aller plus loin dans la conversation et parler de ce rêve obsédant et saisissant. Après le petit déjeuner, Antoinette se rendit à la salle de musique pour pratiquer son piano, et Cassie décida de commencer à s'occuper des fournitures scolaires. Elle attendait lundi avec impatience, afin d'avoir du temps pour elle chaque jour, et que les enfants puissent, espérait-elle, avoir plus de structure et de discipline dans leur vie. marquez là pourriez-vous me montrer vos cartables et me dire ce dont vous avez besoin? Demanda Cassie, espérant que cela ne prendrait pas trop de temps et qu'elle aurait terminé avant qu'Antoinette ne soit prête à l'aider. Mais Marc s'écria Non, je ne veux pas aider, on va jouer à cache-cache dehors. Attrapant la main d'Ella, il fonça hors de la salle à manger. Cassie se précipita vers la porte et leur cria Marc, s'il te plaît, attends une minute, je viendrai jouer avec toi plus tard, mais il faut qu'on finisse ça. Ella, reviens les deux enfants l'ignorèrent complètement et filèrent à l'extérieur. La pensée de les poursuivre dans l'immense jardin, le verger ou la serre, épuisa Cassie mentalement. Elle se débrouillerait toute seule avec ses fichus cartables. Que les enfants se défoulent un peu. Il y avait sûrement une limite aux dégâts qu'ils pouvaient faire dans la demi-heure qu'il fallait pour vérifier leurs affaires et établir une liste. Elle se sentit grandement soulagée d'avoir un peu de calme. La présence constante de tous les trois était oppressante, et leurs questions et demandes incessantes morcelaient sa concentration. Cela ne lui laissait pas l'occasion de remettre de l'ordre dans son esprit confus. Elle désirait ardemment une journée de silence pour rassembler ses pensées, et une semaine de sommeil pour bannir l'épuisement qui faisait de chaque geste un effort. Elle monta péniblement à l'étage pour aller voir dans les chambres, réalisant que puisque Marnie ne lui avait donné aucun détail sur les besoins des enfants et qu'il ne coopérait pas, elle devrait s'en remettre à son propre bon sens et à ses propres suppositions. Elle décida de commencer par explorer leurs cartables pour s'assurer qu'ils n'étaient pas abîmés et ne contenaient pas de mauvaises surprises, comme un sandwich vieux de deux semaines. Ensuite, elle n'aurait plus qu'à trouver ce qui manquait. Vérifier les cartables lui parut une tâche herculéenne. Celui d'elle là contenait très peu de choses, mais de quoi un enfant de cinq ans avait il besoin pour aller à l'école? Elle avait des crayons à papier, des crayons de couleur, un taille crayon et deux cahiers. Le cartable de Marc était un vrai chaos. Sa trousse était restée ouverte et s'était répandue à l'intérieur. Des copeaux de crayons, des feutres sans capuchon, des animaux jouets et des stylos qui fuyaient étaient pêle mêle au fond du cartable, tachés d'encre. Ses cahiers avaient des pages arrachées et les couvertures étaient pliées. Le temps qu'elles finissent de tout trier, Cassie avait fait une longue liste de ce qui devait être remplacé, à commencer par le cartable lui-même. Il était fichu. L'une des sangles était cassée et Marc avait dessiné dessus l'image grossière d'une petite femme aux cheveux fous et au visage sévère. Cassie supposa que c'était un portrait de sa maîtresse. Sa chambre était aussi désordonnée que son cartable et elle passa du temps à la ranger. Des figurines de soldats étaient éparpillées dans tous les coins, et il y en avait une pile sous le lit. C'était incroyable le désordre que Marc était capable de créer en n'en rien de temps. En sortant de sa chambre, Cassie tendit l'oreille en quête du son du piano, mais il s'était arrêté. Comme Antoinette n'était pas montée à l'étage, elle décida d'aller de l'avant et de terminer le travail toute seule. Elle espérait que le cartable d'Antoinette serait en ordre, car elle n'avait pas l'énergie de répéter ce qu'elle venait de faire pour Marc. La sacoche turquoise d'Antoinette était soigneusement rangée, comme elle l'avait espéré, et tout ce dont elle avait besoin semblait être là. Cassie vérifia sa trousse de géométrie, repensant à l'équipement dont elle se souvenait quand elle allait à l'école. Tout semblait correct, même le petit crayon du compas était taillé. Cassie remit le cartable là où elle l'avait trouvé, mais en se penchant, elle aperçut quelque chose au fond de l'étagère en bois qui parut étrangement familier à son esprit épuisé et embrouillé. Elle sortit le sac pour regarder de plus près, et eut le souffle coupé par ce qui s'y trouvait. C'était son portable. Sa coque caractéristique, aux brillants hologrammes argentés, avait attiré son regard dans la pénombre. Cassie le sortit et l'alluma, ses mains tremblant plus fort que jamais, cette fois plus à cause du choc que du stress. Il était en un seul morceau et en état de marche. Elle ne devenait pas folle, elle ne l'avait pas fait tomber ou égarer. Elle serra le téléphone contre sa poitrine, fermant les yeux de soulagement qu'il soit de nouveau en sa possession. Il fallut quelques instants pour que le soulagement s'estompe et qu'une rage aveugle prenne sa place. Antoinette avait dû entrer dans sa chambre, débrancher le téléphone du chargeur, le voler et le cacher là où Cassie ne l'avait trouvé que par pure chance. Antoinette avait agi délibérément et méchamment. Cassie était sûre qu'elle n'avait pas l'intention de le rendre sans l'avoir vu souffrir, si jamais elle avait l'intention de le rendre. À douze ans, Antoinette n'avait aucune excuse pour ce qu'elle avait fait, elle était assez grande pour le savoir. C'était du vol, purement et simplement. Cassie réalisa qu'en termes de réserves émotionnelles, elle venait de toucher le fond. Elle n'avait plus aucune patience, elle en avait assez des manœuvres psychologiques des enfants, de leurs intentions cachées, de leurs rejets provoquants de son autorité et de leur refus de comprendre les concepts fondamentaux du bien et du mal. Elle ne pouvait plus le supporter. Cassie imagina saisir Antoinette par ses fines épaules et la secouer jusqu'à ce que ses dents s'entrechoquent. Elle imagina gifler son expression suffisante, voir sa tête voler sur le côté, cet air supérieur s'effacer. Elle prit un plaisir pervers à calculer précisément la force qu'elle mettrait dans cette gifle. Cassie remit le cartable sur l'étagère et sortit de la chambre en claquant la porte derrière elle. Les priorités d'abord, décida t-elle. Avec son téléphone en sa possession, elle pourrait au moins chercher le numéro de l'agence. Il était déjà dix heures et quart. Il était donc encore très tôt aux États Unis, trop tôt pour appeler l'agence sur le téléphone fixe de Pierre. Elle ouvrait à huit heures du matin. Le temps qu'elle ouvre, Pierre pourrait être de retour du petit déjeuner. S'il était dans le coin, elle ne pouvait pas vraiment entrer dans sa chambre pour passer un appel à l'aide important et confidentiel. Cassie poussa un soupir de frustration. N'y avait-il vraiment nulle part dans ce bled perdu où l'on pouvait passer un coup de fil Maintenant qu'elle avait des minutes prépayées, elle devrait peut-être vérifier. Le domaine était immense. Il devait sûrement y avoir un endroit offrant assez de signal pour permettre un appel téléphonique, même s'il n'était pas assez fort pour transmettre des données. Un brin de signal serait suffisant. Une seule barre et ça pourrait marcher. Tenant son téléphone devant elle, Cassie sortit et partit en chasse. L'avant de la maison ne donna rien. Celle-ci étant nichée entre les collines, Cassie supposa qu'il n'y avait tout simplement pas de ligne de mire vers une antenne disponible. Et que s'il y avait du réseau ailleurs, la masse de pierre du château lui-même l'empêcherait d'arriver de ce côté. Elle avait plus d'espoir pour l'arrière de la maison, où cette vue magnifique et vertigineuse s'étendait sur des kilomètres. Même la moindre trace d'un signal provenant d'une antenne éloignée pourrait suffire. En outre, le ciel était clair, sec et calme aujourd'hui, ce qui signifiait une meilleure chance de réussite. Cassie se souvenait de Zeyn, entre autres lui disant que le mauvais temps affectait la réception. Des nuages épais, de la pluie et même des vents violents pouvaient atténuer le signal. Il l'avait appris de son frère aîné, qui s'occupait de l'entretien des antennes de téléphonie mobile. Cassie tourna à l'angle et descendit l'allée d'allée, le haut mur de pierre du château se dressant sur sa droite. Elle garda son téléphone légèrement tourné vers la vue dégagée sur la gauche, ne sachant pas si cela aiderait, mais ça ne pouvait pas faire de mal. Elle marcha lentement, le regard fixé sur l'écran, où ce logo frustrant, pas de signal, refusait de bouger. Avec toute son attention portée sur son téléphone, Cassie ne vit pas la rigole devant elle, une tranchée profonde dans la pierre. Son pied s'y coinça, et elle faillit tomber, plongeant en avant pour se rattraper et sauver son téléphone. Ce faisant, elle sentit, plutôt qu'elle vit, quelque chose de lourd tomber derrière elle. Elle entendit le bref déplacement d'air Sentit son soudain refroidissement. Un battement de cœur plus tard, l'énorme objet s'écrasa au sol. Cassie pivota en criant de panique. Son cœur lui martelant la gorge, elle regarda avec incrédulité le lourd buste de pierre. Il était tombé juste derrière elle, à un pas seulement de là où elle se tenait, et elle réalisa avec horreur que son trébuchement venait tout juste de la sauver, car si elle n'avait pas plongé en avant, il serait tombé droit sur elle. La tête et les épaules en marbre étaient plus grandes que la taille réelle. La statue devait peser des centaines de kilos. Sa forme solide semblait intacte, mais la grande dalle où elle avait atterri s'était brisée. Abasourdie, Cassie recula pour mieux voir le balcon loin au-dessus. La statue du pilier gauche de la balustrade était encore en place. Celle de droite était tombée. Le balcon lui-même était vide et elle ne vit aucun mouvement. Quelqu'un l'aurait-il vu passer dessous et l'aurait poussé? Elle ne voulait pas le croire, mais c'était si proche, si incroyablement proche. Elle avait failli de justesse se faire écraser. C'était peut-être opportuniste, mais elle devait admettre cette réalité qu'on aurait vraiment pu essayer de la tuer. La seule question était de savoir qui. Chapitre 26 Tandis que Cassie restait figée, réalisant que la statue aurait pu être jetée délibérément sur elle, elle entendit un cri. Qu'est ce qui se passe? Qu'est ce que c'était? Pierre contourna le coin en courant et fonça vers elle. Cassie le vit sincèrement étonné tandis qu'il la fixait, puis levait les yeux sur le balcon, le souffle court, ce qui lui fit se dire que ce n'était pas Pierre qui avait balancé ce buste par dessus bord. Il lui aurait été impossible de courir depuis ce balcon supérieur, de descendre l'escalier, de sortir par la porte d'entrée et de faire le tour de la maison en si peu de temps. Elle est tombée pendant que je passais, dit elle d'une voix aiguë et tremblante. Elle a failli m'atteindre. Elle est tombée. Cette statue ne pouvait pas tomber comme ça. Elle est en place depuis des siècles. Pierre recula pour avoir une meilleure vue. Regarde, on peut voir le socle où elle reposait. Il s'accroupit et examina attentivement la statue. « Intacte, mais il faudra remplacer la dalle », conclut-il. « Je vais aller dire au vigneron de faire le nécessaire pour la remettre à sa place. »« Ça a failli me tuer », dit Cassie. Sa tête lui tournait maintenant à cause du contre-coup. À une demi-seconde près, elle n'aurait eu aucune chance. Pierre fronça les sourcils. Cassie comprit qu'après ce qui s'était passé entre eux, il ne manifestait aucune compassion. En fait, elle n'aurait même pas dû lui dire qu'elle venait d'échapper à la mort. Elle ne voulait pas faire l'objet de l'attention de Pierre pour quelque raison que ce soit. C'était mieux que son regard l'effleure avec dédain, comme si elle était insignifiante dans sa vie et que ses problèmes ne le concernaient pas. Tu es blessée? lui demanda t-il, d'un ton qui lui disait qu'il savait qu'elle ne l'était pas. Non, je ne suis pas blessée, ça va, répondit elle sur la défensive. Si les meubles ont été sortis de la chambre pour la nettoyer, un domestique aurait pu la renverser par mégarde, supposa-t-il. Ou l'un des enfants, pensa Cassie avec un frisson. Si c'était le cas, ce n'était peut-être pas du tout un accident. Pierre se dirigea vers le garage, monta dans la voiturette de golf et emprunta la piste sablonneuse qui menait au vignoble. Cassie décida de voir si elle pouvait découvrir par elle-même qui avait été là-haut. Le balcon faisait partie d'une des suites d'invités dans l'aile vide de la maison. Elle supposa que quelques chambres avaient été occupées hier soir par les invités des funérailles, mais elle ignorait lesquelles. À l'étage, elle découvrit que toutes les chambres étaient déverrouillées, leurs portes fermées. Elle se trompa d'abord de pièces. L'intérieur de la maison avait l'air différent et semblait plus grand que l'extérieur. La chambre suivante fut la bonne. Elle était impeccable, avec un lit à baldaquin soigneusement fait, aux oreillers bordeaux et au couvre-lit crème. La porte du balcon était ouverte, mais il n'y avait personne dehors. Elle gagna le balcon et regarda en bas, l'estomac noué en revoyant la chute. Mal à l'aise, elle jeta un regard derrière elle et s'éloigna rapidement de la rambarde. Elle se demanda si elle serait capable de regarder à nouveau en bas depuis une hauteur, sans se remémorer le choc qu'elle avait ressenti et les vertiges qui l'avaient submergée quand elle avait vu le corps de Margot. Elle essaya de bouger la statue restante. Avec sa basse étroite, ses épaules larges et sa grosse tête imposante, elle était lourde et instable. Il n'aurait pas fallu beaucoup de force pour la pousser. Physiquement, même elle aurait pu le faire. Une chose était certaine, il n'y avait pas de personnel d'entretien ménagé dans cette pièce, ni même dans cette aile elles avaient dû finir leur travail plus tôt. Pierre n'avait même pas émis la possibilité que ce soit l'un des enfants, même s'il était évident qu'en dehors du personnel, ils étaient les seuls à pouvoir le faire. Cassie se demanda si Pierre n'y avait vraiment pas pensé, ou, plus probablement, s'il ne s'autorisait pas à envisager cette possibilité. Elle supposa que c'était une extension de sa conviction que le nom de la famille devait rester à tout prix propre et sans tâche. Ayant échappé de justesse à la mort, elle ne savait toujours pas qui était le coupable, et l'incident n'avait fait qu'attirer à nouveau l'attention de Pierre sur elle. De plus, elle était convaincue qu'il n'y avait aucun réseau dans les environs. Il n'y en avait pas eu la moindre trace en bas, et quand elle avait vérifié son téléphone sur le balcon, L'entêté logo Pas de signal avait refusé de bouger. Frustrée, Cassie réalisa qu'elle devait attendre que Pierre s'en aille peut-être qu'il le ferait plus tard et qu'elle pourrait alors utiliser son fixe pour contacter l'agence et au diable les conséquences s'il la prenait. Tout ce qu'elle avait essayé de faire aujourd'hui s'était soldé par un désastre, et y repenser lui donna envie de fondre en sanglots. Antoinette avait volé son téléphone quelqu'un avait essayé de la tuer. Tout le monde semblait la détester, sauf Marnie, la seule personne amicale du château. Elle quitta la pièce et, se rappelant ses responsabilités, partit à la recherche des enfants. Ella était dans sa chambre et Antoinette dans la bibliothèque. Elle était levée dans un fauteuil en train de lire et sourit innocemment à Cassie quand elle entra. Cassie réprima l'envie de lui crier qu'elle était une voleuse, voire une meurtrière en puissance. Si la statue avait été poussée délibérément de son support, elle savait quel enfant était sans doute le plus coupable. Il lui fallut tous les fragments restants de sa maîtrise de soie pour lui demander si elle savait où était Marc et quand Antoinette haussa les épaules avec dédain, Cassie fut tentée d'empoigner sa queue de cheval brillante et de la tirer jusqu'à ce qu'elle hurle. Marc était dans la cuisine. Il avait fait une rasia dans le frigo et trouvé un plat de gâteau glacé. Il en avait laissé tomber un par terre et sortait triomphalement avec un autre de l'arrière cuisine lorsque Cassie arriva. Elle parvint à le rattraper alors qu'il se dirigeait vers le verger, après avoir mangé la moitié du gâteau sur le trajet et jeté l'autre moitié sur le dallage immaculé en une pluie de miettes. C'est presque l'heure du déjeuner, Marc. Tu dois rentrer maintenant, le pria t-elle. J'ai pas faim, s'écria t-il joyeusement et elle dut le pourchasser de nouveau jusqu'à la serre aux vitres brisées. Cassie supposa qu'elle devait en parler à quelqu'un, mais elle n'en avait pas l'énergie, et si elle le faisait, elle devrait expliquer que Marc l'avait fait sans surveillance. Il valait mieux laisser tomber. Son seul lien ténu avec la raison était la clef de sa chambre. Elle sentait sa forme rassurante dans sa poche. La nuit, elle verrouillait sa chambre et personne ne pouvait l'atteindre. Elle s'y cramponnait comme à un radeau de sauvetage, comme si c'était la seule chose dont elle avait encore le contrôle. Pierre se joignit à eux pour le déjeuner, ce qui étonna et consterna Cassie. Encore plus déconcertante était sa bonne humeur. Puis je te servir du poulet rôti, Cassie? demanda t-il d'un air enjoué. Elle se força à lui sourire poliment. Marnie l'a préparé elle même avant de partir. Je pense que c'est son plat le plus réussi. Poulet rôti, ratatouille et sauce. Simple et classique. Ça te plaît, Antoinette? Celle ci sourit avec coquetterie, manifestement ravie d'être au centre de l'attention de son père. C'est délicieux, acquiesça t-elle. Margot ne prenait jamais de sauce, observa Ella. Je ne crois pas qu'elle aimait ça. Personne ne répondit à cette observation, et il y eut un court silence après ces paroles. Marc jeta un coup d'œil à la chaise vide de Margot avant de replonger dans son assiette. Où est passé Marnie? demanda Cassie inquiète. Elle espérait pouvoir lui parler cet après-midi et savoir si elle pourrait utiliser un autre téléphone. Elle a demandé à prendre le reste de la journée, elle avait une course à faire. Elle a eu quelques jours de congé récemment, mais c'est une travailleuse acharnée. On ne peut pas reprocher aux travailleurs acharnés leur temps libre, surtout lorsqu'ils sont si performants. Après tout, ce sont ceux qui mettent du cœur au travail qui sont bien récompensés. C'est toujours important de satisfaire son employeur. Son regard croisa celui de Cassie par-dessus la table et il lui jeta un coup d'œil lourd de sens. Elle n'eut aucun mal à comprendre les insinuations. Que Pierre dise cela devant les enfants, le lendemain des funérailles de Margot, lui donna envie de vomir. Avec un effort surhumain, elle garda une expression neutre et força la nourriture à descendre, espérant que ce terre l'aiderait à redevenir invisible pour lui. Je vais en ville cet après-midi pour affaires annonça Pierre quand les assiettes furent débarrassées. Tu reviens quand, papa? demanda Antoinette. En début de soirée. Peut on jouer à un jeu? Elle sourit à nouveau. Peut-être. Tu sais combien j'aime les jeux. Se disant, Pierre regarda Cassie, pas sa fille. Elle pensait qu'il allait dire autre chose, mais à ce moment là on frappa à la porte d'entrée. Pierre se leva. Je vais y répondre. Je suis sur le point de partir de toute façon, dit il. Cassie se leva également, avec l'impression que ses nerfs avaient été passés au broyeur. Elle sortit de la salle à manger et surprit la discussion cassante de Pierre avec le visiteur à l'entrée. Madame, il n'y a rien à voir ici. Les funérailles de Margot ont eu lieu hier, et je quitte la maison maintenant. Si vous voulez passer du temps à évoquer son souvenir, dirigez vous plutôt vers le cimetière où ses cendres sont enterrées. Il marqua une pause. Vous êtes journaliste? Alors vous pouvez contacter mon bureau pour obtenir une copie de sa nécrologie officielle. Quelques informations sur sa vie ainsi que d'excellentes photos sont disponibles. Voici ma carte de visite avec les détails pertinents. Je suis toujours en deuil et je n'ai rien à vous dire. Pierre claqua la porte derrière lui et quelques minutes plus tard, Cassie entendit sa voiture s'en aller. C'était le moment d'agir, décida Cassie. Elle n'allait pas attendre une minute de plus. Elle gravit l'escalier et longea le couloir jusqu'à la chambre de Pierre. Sortant son téléphone portable de la poche de sa veste, elle parcourut ses contacts et trouva le numéro de l'agence. Puis, levant le menton avec détermination, elle tourna la poignée de la porte. C'était fermé à clef. La réalité la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Elle réessaya, secouant la poignée, cette porte n'avait jamais été fermée à clé, et maintenant elle l'était indubitablement. Elle n'avait aucun moyen d'accéder à la ligne fixe maintenant. Elle ne pouvait pas passer d'appel cet après-midi et recevoir un bon conseil. Son unique moyen de communication avait disparu. Cassie s'éloigna de la porte anéantie. Ce devait être sa punition pour l'avoir rejetée la veille. Comment savait-il qu'elle était entrée dans sa chambre la première fois? De toute évidence, il l'avait devinée ou sentie, et elle avait été découverte. Et maintenant, il lui disait qu'il savait et qu'il allait l'arrêter, parce que cela faisait partie du jeu de pouvoir auquel il jouait. En y songeant, en repensant à son étrange satisfaction pendant le déjeuner, Cassie eut la prémonition d'un autre désastre. Elle n'avait pas fermé sa chambre à clef ce matin là, comme Marny lui avait demandé de le faire, parce qu'elle et les enfants étaient à la maison et qu'il fallait faire le ménage. Cassie retourna dans le couloir, sortit la clef de sa poche et ferma la porte de la chambre. Puis elle essaya de la verrouiller. Mais cette fois la clef n'entrait pas correctement. Elle ne convenait plus du tout, et Cassie ne pouvait pas la faire tourner. Elle la remua, la secoua, la poussa et la tira. Elle la tordit de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle s'arrête, sachant que si elle continuait, la petite tige métallique se briserait dans la serrure. Elle la sortit et la renfonça et essaya une deuxième fois, au cas où la serrure aurait un pépin, un éclat de rouille à l'intérieur, ou si sa propre panique lui avait fait faire n'importe quoi. C'était pareil, peu importe combien de fois elle essaya. Elle ne pouvait pas tourner la clé ni verrouiller sa porte. Pierre avait découvert qu'elle s'enfermait pour sa sécurité. Ce soir, il s'assurait qu'elle ne le pourrait pas. Chapitre vingt-sept. Cassie balança de toutes ses forces à travers sa chambre la clef inutile qui heurta le mur et cliqueta en tombant par terre. Elle ne prit même pas la peine de la ramasser. Elle lui tourna le dos et claqua la porte en partant. La peur sous-jacente avec laquelle elle vivait depuis la mort de Margot enfla en une véritable panique. Elle se dit que c'était juste Pierre qui jouait à la guerre des nerfs avec elle et la punissait de s'être battue contre lui hier elle tenta de se rassurer en se disant qu'elle avait encore le choix et qu'elle pourrait dormir dans la chambre d'Ella s'il le fallait. Mais elle ne pourrait pas faire ça toute la nuit, tous les soirs. Elle ignorait quand son passeport lui serait rendu et ne pouvait appeler personne à l'aide. Cassie respira profondément. Elle ne s'était jamais sentie aussi piégée ou vaincue. Elle habitait dans la maison d'un adultère qui lui tournait autour et d'un meurtrier présumé. Elle n'avait aucune idée s'il s'agissait d'une seule et même personne ou de deux personnes différentes. Qui avait poussé Margot sur le balcon Et qui avait poussé cette statue du piédestal, l'envoyant s'écraser par terre sur son passage Pourquoi ou oh pourquoi avait-elle pris une dose si excessive de ces médicaments cette nuit-là, provoquant confusion, cauchemar et souvenirs troubles, de sorte que même elle ne savait pas ce qui s'était réellement passé, ni quel rôle elle avait joué dans tout cela elle se traîna au bas des marches et jusque dans la cuisine, se demandant où Marny était parti. Pour autant qu'elle sache, Marny avait en fait démissionné de son travail. Elle ne pouvait plus croire ce qu'on lui disait. Une autre employée de cuisine travaillait dans l'arrière cuisine, mais la cuisine elle même était déserte. Dans la section de préparation des aliments se trouvait un grand bloc de bois où étaient rangés les couteaux à hacher et à découper. Ils étaient tous à leur place, leurs poignets sortant du bloc prêts à être utilisés. Cassie inspecta tous les couteaux enfoncés dans ce bloc de bois. Elle prit ce qu'elle espérait être l'arme la plus mortelle de toutes, de longueur moyenne, avec une lame argentée dure et brillante qui s'effilait en une méchante pointe. Son fil biseauté était d'une finesse mortelle. Elle imagina l'attraper et poignarder quelqu'un avec, pointe en avant, ou utiliser ce fil acéré pour trancher dans la chair, ouvrir une profonde entaille dans la gorge de l'agresseur. Tenant le couteau, elle se sentit comme à un carrefour. Serait elle capable de l'utiliser? Cassie secoua la tête. Aussi tentante que soit la protection offerte par ce couteau, c'était une arme trop meurtrière, et de plus elle risquerait de se figer au lieu de l'utiliser, car sa capacité à blesser gravement ou à tuer la terrifiait. Il y avait aussi la possibilité qu'on puisse le lui prendre. Du coup, ce serait elle la victime, et Pierre pourrait dire en toute sincérité qu'il s'en était servi en légitime défense. Il lui fallait quelque chose de moins mortel, qui serait quand même un moyen de dissuasion efficace. Une bombe lacrymogène aurait été idéale, mais elle était sûre qu'il n'y en avait pas dans le château. Est ce que ça marcherait avec juste du poivre? Cassie rejeta également cette idée. Ce ne serait pas pratique à utiliser. C'est alors que la solution lui vint. Insecticide. Elle avait besoin d'une bombe insecticide puissante. Le poison aveuglerait ou étoufferait Pierre temporairement, il serait facile à utiliser, et la bombe elle-même pourrait aussi servir d'arme d'autodéfense si elle frappait en pleine figure. Dans un château vieux de plusieurs siècles, il devait sûrement y avoir beaucoup d'insectes et donc du spray. Elle supposait qu'il était rangé dans l'arrière-cuisine ou dans le placard à balai. Cassie attendit quelques minutes que la bonne s'en aille, puis explora l'arrière-cuisine, où elle trouva un carton presque plein d'un insecticide d'apparence toxique, utilisé contre les blattes et autres parasites de cuisine. Elle en pulvérisa une bouffée en l'air pour tester, attendit quelques secondes, puis le ventila vers elle. Les vapeurs étaient asphyxiantes et larmoyantes. Viens me chercher, Pierre, chuchota-t-elle en serrant la bombe, le doigt bien ferme sur l'embout. Voyons comment ça se passe pour toi. Malgré la bravade de ses paroles, sa terreur n'avait pas diminué. En fait, elle avait empiré. Préparer sa défense l'obligeait à reconnaître la réalité de ce qu'elle pensait qu'il préparait. Elle emporta la bombe dans sa chambre et la cacha sous son oreiller. Puis elle ferma la porte et partit à la recherche des enfants. Elle chercha en vain pendant près d'une demi-heure, s'inquiétant de plus en plus d'où ils étaient et des catastrophes qu'ils auraient pu causer, quand un bruit de moteur de voiture l'alerta. Elle se précipita au garage. Marc avait volé les clés sur le plateau dans le vestibule et avait ouvert la Peugeot. Il avait réussi à démarrer la voiture et il était perché au bord du siège conducteur, serrant fermement le volant, le pied à plat sur l'accélérateur. Le moteur grondait de protestation et l'air était rempli d'épaisse fumée. Antoinette avait emmené Ella voir le spectacle et se tenait devant le garage, hurlant de rire. Arrête ça tout de suite cria Cassie, mais dans le rugissement de la voiture, personne ne l'entendit. Elle se précipita dans le garage, toussant dans le nuage de fumée asphyxiante. Elle agrippa la poignée de la portière et l'ouvrit, se demandant pourquoi elle était collante au toucher. Dehors tout de suite Ordonna-t-elle. Marc se cramponna au volant, braillant en signe de protestation. À l'intérieur, Cassie vit avec horreur qu'il avait apporté une tasse de cacao et une tartine au miel dans la voiture. Comme on pouvait s'y attendre, le cacao s'était répandu partout sur le siège passager. La figure et les mains de Marc, ainsi que le volant de la voiture, le levier de clignotant et la plupart des boutons du tableau de bord étaient collants de miel. Cassie se demanda tout à coup à quel point Antoinette aurait pu être complice de tout ça. Elle pouvait l'imaginer en train de donner à Marc le cacao et la tartine et lui suggérer d'aller faire un tour en voiture. Dehors, cria Cassie. L'air du garage était saturé de fumée. Elle saisit le bras de Marc et le sortit de la voiture, puis coupa le contact. La clé était également collante. Toutes les surfaces à portée étaient tachées de miel. Marc, c'est quoi ce bordel? Tu sais que tu n'as pas le droit d'entrer dans le garage? cria-t-elle, le traînant dehors, où l'air était heureusement plus pur. Elle se tourna vers Antoinette, se fichant de lui montrer à quel point elle était furieuse. Tu es restée à regarder tout ce temps, pourquoi tu l'as laissé faire? Antoinette haussa simplement les épaules en écartant les bras. Ce geste, ainsi que tout son comportement, n'indiquaient rien d'autre que du mépris pour Cassie. Ella se détourna, comme si elle ne se souciait plus de continuer son comportement manipulateur maintenant que Cassie essayait d'imposer la discipline. Cassie en conclut donc qu'Ella ne l'aimait pas vraiment. Elle capitalisait juste sur sa faiblesse et le fait que Cassie était de la pâte à modeler entre ses mains. Son cerveau était en surcharge. Elle pouvait presque sentir les neurones brûler un à un. À la maison cracha-t-elle. Comment faire comprendre aux enfants à quel point cela avait été destructeur et carrément dangereux Si Marc avait enclenché une vitesse, il aurait pu écraser elle là. Je ne veux pas rentrer à la maison, commença Marc, mais Cassie lui cria dessus de toutes ses forces, se penchant pour que sa bouche ne soit qu'à quelques centimètres de son oreille. Tu rentres maintenant Elle les emmena à l'intérieur, Manu Militari. Marc traînait les pieds dans un silence boudeur. Elle a donné des coups de pied dans les graviers et se plaignait. Antoinette gloussait encore, comme si elle trouvait toute la situation, y compris la perte de contrôle de Cassie, trop drôle pour dire quoi que ce soit. Venez avec moi, dit-elle. Elle grimpa à l'étage, mais en haut de l'escalier, elle se tourna vers l'aile des invités. Elle poussa Marc devant elle, avec Ella qui geignait dans son sillage et tapait sur les portes avec ses mains en passant. Cassie entendait le rire argentin d'Antoinette qui venait de derrière. Elle ouvrit brusquement la porte, traversa la chambre à grands pas et montra à travers la porte vitrée coulissante le socle vide sur le balcon où s'était dressée la statue. Lequel d'entre vous a poussé cette statue Dites-le-moi maintenant, parce que je marchais sous le balcon quand elle est tombée et elle a failli me tuer. Elle scruta leurs visages. Elle a mutine, Marc provocateur, Antoinette prétentieuse. Elle s'attendait à ce qu'il faille un certain temps avant que l'un d'eux n'avoue et à devoir surveiller leur langage corporel en quête de signes de culpabilité. Mais Marc s'écria aussitôt, comme s'il était fier de ce qu'il avait fait "C'était moi, je me cachais là parce qu'on jouait à cache-cache." Ça avait l'air bancal alors je l'ai poussé. "Je suis trop fort. Regarde, je peux faire tomber l'autre aussi." Il se précipita vers la porte vitrée. Antoinette hurlait de rire. Cassie plongea après lui, se rappelant que Pierre avait dit qu'une équipe allait remettre la statue en place au cours de l'après midi, ce qui signifiait qu'il pouvait bien y avoir des gens en dessous. Non. Cria t-elle, c'est dangereux, tu pourrais blesser quelqu'un. Je m'en fiche. Cria Marc. Il lui donna des coups de pied dans les tibias, ses orteils la martelant douloureusement dans ses efforts pour la faire lâcher prise. Comme elle luttait contre ce gosse insupportable, aux doigts encore collants de miel, Cassie se sentit consumée par une rage brute et violente. Elle le traîna loin de la porte. Il criait de colère, le visage cramoisi, ses mains griffues laissaient des taches géantes sur la vitre. Tu vas arrêter d'agir comme ça. Il faut que tu te mettes à écouter, lui hurla-t-elle. Je veux pas, je veux pas, cria-t-il en retour, sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Cassie prit le jeune garçon à bras le corps et le porta à travers la pièce jusqu'à la grande armoire en acajou. Elle ouvrit la porte, le poussa dedans et la referma en s'appuyant contre elle pour faire bonne mesure. Maintenant, reste là-dedans et réfléchis à ce que tu as fait! cria-t-elle. Pendant un moment régna un silence stupéfait, alors que tous prenaient conscience de ce qui venait de se passer. Puis Marc se mit à hurler, terrifié et hystérique. Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Il cogna à la porte, ses poings tambourinant contre le bois, mais Cassie poussa d'autant plus fort. Elle haletait, son cœur battait la chamade et l'adrénaline montait en elle. Elle n'allait pas le laisser sortir, certainement pas. Marc se mit à pleurer. J'ai peur du noir, laisse-moi sortir, s'il te plaît! Serrant les dents, Cassie s'appuya fermement contre la porte. Elle entendait dans son ton la peur à l'état brut et savait à quel point il était effrayé. Mais sa colère était plus puissante que la voix intérieure qui lui disait qu'elle était injuste envers lui. Ella se mit à pleurnicher. Il a peur là-dedans, Marc a peur J'ai eu peur aussi quand cette statue s'est écrasée derrière moi. Marc a besoin d'apprendre à réfléchir avant d'agir, s'écria Cassie. Et ne pas faire volontairement des choses dont il sait qu'elles sont vilaines et destructrices. Les pleurs de Marc s'étaient calmés, ses sanglots étaient désespérés à présent. J'ai tellement peur. Gémit il. S'il te plaît, laisse moi sortir. Antoinette marcha vers Cassie, du mépris dans le regard. Laisse le sortir, exigea t-elle. Tu es cruelle. Je suis cruelle. Cassie haussa les sourcils, une nouvelle vague de colère surgissant en elle. Tu devrais peut-être pointer ce doigt vers toi, pas vers moi. Antoinette était furieuse d'être défiée. Elle s'avança, le visage sombre, et tenta d'écarter physiquement Cassie de la porte. Cassie fit ce que ses doigts avaient eu envie de faire toute la journée. Elle leva la main et gifla fortement Antoinette en pleine figure. La fille recula, tomba à genoux et se courba, le visage dans ses mains, et gémit d'un ton agonisant. Aïe, aïe, aïe! Elle a accouru et s'agenouilla à côté d'elle, sanglotante, pour aider Antoinette à se frotter la figure. Dans la garde-robe, les cris de Marc n'étaient plus que des chuchotements rauques et désespérés. Laisse-moi sortir, s'il te plaît, laisse-moi sortir. La peur dans sa voix fit remonter des souvenirs en cassis. Elle avait des flashbacks d'une expérience oubliée qu'elle avait profondément enterrée. Elle eut soudain l'impression bizarre d'être à l'intérieur de ce placard. Elle savait exactement ce que ça faisait d'être là-dedans. Comment le minuscule faisceau de lumière rétrécissait puis disparaissait complètement une fois la porte fermée, la laissant dans une obscurité oppressante et sans air. Comment l'espace de l'armoire semblait soudain trop petit pour se retenir et contenir sa panique mais elle avait beau hurler aussi fort qu'elle pouvait, elle ne pensait pas que cela pouvait s'entendre à l'extérieur de cette solide porte. Elle savait que son père se tenait devant cette porte parce qu'elle l'entendait crier, même si elle ne comprenait pas vraiment ce qu'il disait. Ça n'avait pas d'importance. Il était en colère parce qu'elle avait été vilaine, et c'est pourquoi il l'avait traînée à l'étage et poussée dans ce grand placard sombre qu'il avait fermé à clef. Il était parti, se souvint Cassie. Elle avait attendu là-dedans pendant des heures, Jusqu'à ce que sa gorge soit à vif à force de crier et que ses talons lui fassent mal à force de cogner la porte, à tenter désespérément de la forcer. C'était chaud, sans air, et chaque respiration était laborieuse. Son père ne l'avait pas laissé sortir. Finalement, ce fut Jackie qui monta la libérer. Soudain incapable de continuer la punition, Cassie s'éloigna de l'armoire et ouvrit la porte. Marc était allongé par terre, tout comme elle l'avait fait. Il sortit en rampant, ébloui par la lumière, et Cassie se rappela comment la lumière avait été vive après l'obscurité suffocante. Cela avait été douloureux, et elle avait eu du mal à ouvrir les yeux pendant un certain temps. Le visage de Marc était gonflé et imbibé de larmes, et il était plus abattu qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. En passant devant Cassie, il marmonna quelque chose qu'elle ne put discerner. Antoinette se releva et voulut l'enlacer, mais Marc la repoussa et sortit de la pièce, prenant la direction de sa chambre. Antoinette et Ella, encore sanglotantes, le suivirent en silence. Dans sa terreur et son traumatisme, Cassie se souvint qu'elle avait également repoussé sa sœur. Elle l'avait fortement poussée et Jackie avait hurlé en tombant dans le noir. Cassie secoua violemment la tête. Elle confondait à nouveau souvenirs et rêves. Ce n'était pas arrivé. Elle avait poussé Jackie, certes, mais ce n'était qu'une petite poussée faible et douce. Elle n'était pas au bord d'un ravin, elle n'avait pas essayé de sauver sa vie, ses mains aux ongles rouges s'agrippant dans le vide en tombant. Cassie ferma la porte de l'armoire et découvrit que sa rage s'était évaporée. À la place, elle était envahie de culpabilité. Elle tenta de se dire que ses actions avaient été justifiées, que ses enfants étaient devenus si sauvages qu'ils avaient eu besoin d'une bonne dose de discipline que ça n'avait pas fait de mal à Marc de passer quelques minutes dans une armoire, et qu'Antoinette avait plus que mérité cette claque. Cela ne l'empêcha pas de reconnaître ce qu'elle ressentait en elle, même si cette réalité la hérissait. Elle se comportait exactement de la même façon que son père abusif. Elle avait passé des années à essayer de lui échapper, à lui tourner le dos. Elle avait cru fermement qu'elle était meilleure, et qu'en tout état de cause, elle avait été la victime et non l'oppresseur. Rien de tout cela ne l'avait aidée. Elle devait faire face à la réalité qui était qu'elle avait fini par devenir comme lui. Chapitre 28 Après avoir quitté la pièce, Cassis attendait à ce que les enfants courent par défi dans toute la maison. Elle fut surprise de les voir entrer docilement dans leur chambre. Ils étaient si dociles et silencieux qu'elle supposa que l'incident les avait tous traumatisés. Elle descendit au rez de-chaussée et fouilla l'arrière cuisine à la recherche de produits de nettoyage. Elle fit de son mieux pour remettre la voiture en état, en essuyant toutes les surfaces et en épongeant le plus possible le cacao renversé sur le siège en cuir. Elle était contente de cette activité qui lui permettait d'échapper à ses émotions brisées. Elle avait dépassé les bornes avec les enfants. Elle était devenue leur agresseur au lieu de leur protecteur. Elle se repassa l'incident dans sa tête, afin d'y voir plus clair, de déterminer à quel point son comportement avait été inacceptable et si elle pouvait se racheter d'une manière ou d'une autre. En y resongeant, elle découvrit qu'elle ne se souvenait plus exactement de ce qui s'était passé dans cette chambre d'amis. Elle ne se rappelait pas tous les détails. Comment la situation s'était-elle aggravée Qu'avait dit Marc pour qu'elle réagisse de cette façon elle supposait qu'elle les avait emmenés dans cette chambre pour les punir de ce qui s'était passé dans la voiture. Mais en s'efforçant de se souvenir, elle redevint petite et impuissante, enfermée elle-même dans le placard. Puis, quand elle essaya de nouveau, elle se retrouva au bord de ce ravin, piégée dans le cauchemar où elle affrontait sa sœur. Cassie se demanda si son esprit effaçait délibérément les souvenirs pour la protéger d'une surcharge de stress. Elle espéra que les détails lui reviendraient quand elle serait mieux à même de les gérer. En attendant, elle avait l'impression que ses pensées étaient tiraillées dans une centaine de directions différentes. Elle n'arrêtait pas de penser à l'expression écartelée par des chevaux sauvages. C'est exactement ce qu'elle sentait qu'il arrivait à sa santé mentale. Il y avait trop de soucis incontrôlables, elle n'avait aucun soutien, et sa plus grande crainte était que le pire reste à venir. Elle avait continuellement envie de pleurer, ou croyait avoir pleuré, mais quand elle portait une main vers ses yeux, elle les trouvait secs. En apparence, elle ne montrait rien, mais en elle même, elle était effondrée. En consultant l'heure sur son téléphone, elle réalisa que c'était la fin de l'après midi. Les heures s'étaient écoulées comme dans un rêve. Marnie n'étant pas là, il était de sa responsabilité de s'assurer que le dîner soit prêt et que les enfants prennent leur bain et enfilent leur pyjama, à condition qu'ils soient disposés à lui parler. Rassemblant ses pensées en un semblant de normalité, elle descendit au rez-de-chaussée. La cuisine était vide. La femme de ménage qui avait fait la vaisselle plus tôt s'était visiblement absentée pour la journée. En raison de la disparition inattendue de Marnie, aucun menu n'avait été planifié pour le dîner. Cassie explora le frigo, le congélateur et l'énorme garde-manger. Il y avait beaucoup d'aliments de toutes sortes, y compris un paquet de six mille chèques amincissants dans le garde-manger qui ne semblait pas à sa place par rapport aux autres ingrédients. Elle supposa qu'il appartenait à Margot et qu'il n'avait plus d'usage. Au fur et à mesure qu'elle faisait l'inventaire de ce qui était disponible, quelques options de repas lui vinrent à l'esprit. Puis elle se dit. Si je demandais aux enfants. Peut-être pourrait-elle restaurer sa relation avec eux et absoudre une partie de la culpabilité qu'elle ressentait si elle ouvrait elle-même les voies de communication. Elle les appela tous dans la chambre d'Antoinette. Ils se présentèrent avec obéissance et la regardèrent en silence. Cassie fut de nouveau frappée par leur changement de comportement depuis qu'elle avait complètement perdu la tête. Je veux vous dire que je suis désolée d'avoir crié tout à l'heure, dit elle. J'ai perdu mon sang froid et je me suis très mal comportée. Donc je dois dire que je suis désolée. J'étais en colère, mais je n'aurais pas dû dire et faire ce que j'ai fait. Ce n'est pas bien de faire ça, mais, si ça arrive, il est important de s'excuser par la suite. Je sais maintenant que si je me retrouve dans la même situation, je dois contrôler ma colère et ne pas la laisser me contrôler. C'est ce que j'ai appris de tout ça. Moi aussi je suis désolée, dit Antoinette d'une petite voix. Je n'ai pas essayé d'arrêter Marc en fait, je lui ai dit de le faire. Et je suis désolée aussi, dit Marc en frottant ses pieds sur le carrelage. Je sais que j'ai été vilain, j'ai été très méchant. À la surprise de Cassie, il semblait vraiment honteux plutôt que fier de son comportement. Elle l'enlaça en silence, s'agrippant à ses jambes. "Je voulais vous demander ce qu'on va manger pour le dîner", reprit Cassie. "Marnie n'est pas là, alors j'ai quelques idées en tête. On pourrait soit manger une omelette au jambon et au fromage, soit une tarte au bœuf et aux champignons. Il y en a une dans le congélateur, soit des crêpes au sucre et à la cannelle. J'aimerais bien des crêpes." Dit-elle là avec hésitation. Il y eut un refrain de Moi aussi de la part d'Antoinette et de Marc. D'accord. Si vous voulez, vous pouvez m'aider à les faire maintenant. On peut les garder au chaud dans le four pendant que vous vous baignez et que vous vous changez. Cassie descendit avec les enfants, éprouvant un étrange sentiment de dissociation d'avec la réalité. Tant qu'elle vivait dans l'instant, elle allait très bien. Dès qu'elle songeait à ce qui s'était passé, ou à ce qui allait se passer, son cerveau se mettait en surcharge et elle commençait à trembler de peur. Elle décida qu'il valait mieux rester dans le moment présent, car c'était le choix plus sûr pour sa santé mentale. Dans la cuisine, les enfants semblaient vraiment apprécier la préparation des crêpes. Cassie supposa qu'ils n'avaient guère d'occasion de cuisiner avec autant d'employés à leur service. Après avoir mélangé la pâte et préparé la garniture cannelle-sucre, elle confia à chacun un travail. Antoinette était chargée de verser la pâte dans la poêle. Puis, lorsque Cassie retournait les crêpes, Ella était responsable du saupoudrage du mélange cannelle-sucre. Debout sur une chaise basse et penchée sur la grande table en bois au centre de la cuisine, elle semblait fière et heureuse dans son rôle. Enfin, Marc était chargé d'enrouler les crêpes et de les disposer sur une assiette. Une demi-heure plus tard, l'assiette était remplie de crêpes et Cassie la recouvrit de papier aluminium et la mit au four. Elle était énormément soulagée d'avoir réussi à rattraper un peu la journée après son début désastreux. Maintenant, il fallait qu'elle donne leur bain aux enfants et les prépare pour le dîner. Ses pensées s'égarèrent vers ce qui pourrait se passer plus tard dans la soirée, mais Cassie les bloqua. Elle n'allait pas rentrer là-dedans. Peu importe le dénouement de la soirée ou ce qu'elle finirait par faire, au moins les enfants se souviendraient tous du plaisir qu'ils avaient eu à cuisiner l'après-midi. J'aime bien la décoration dans tes cheveux, Cassie, dit-elle là une fois dans son bain. Merci, apprécia Cassie. Elle ne se souvenait même pas de ce qu'elle avait mis dans ses cheveux, ni quand. Peut-être les avait-elle attachés avant de préparer le repas pour éviter qu'ils la gênent. Elle posa la main sur sa queue de cheval et sentit le léger contact de la soie. Tirant ses cheveux sur le côté, elle aperçut un bout de tissu vert émeraude. L'angoisse lui noua le ventre, car elle n'avait absolument aucun souvenir d'avoir noué dans ses cheveux l'écharpe de soie que Pierre lui avait donnée. Une fois les enfants lavés, habillés et en bas dans la salle à manger, Cassie demanda à Antoinette de leur lire une histoire avant le dîner. Réalisant que ses vêtements étaient tachés et souillés par les activités de la journée, elle s'empressa de filer sous la douche et de se changer avant de les rejoindre. Après avoir enfilé un jean et un chandail propre, Cassie retourna dans sa chambre pour mettre ses vêtements sales dans le panier à linge et récupérer la liste des fournitures scolaires qu'elle avait faites plus tôt dans la journée. À présent que les enfants étaient plus coopératifs, elle pouvait la parcourir avec eux pendant le dîner et voir s'il manquait quoi que ce soit. Elle jeta les vêtements dans le panier et prit la liste sur la table. Puis elle se retourna vers la porte et porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. Pierre était assis sur la chaise à dossier haut, près de son lit. Le regardant avec horreur, Cassie sentit son cœur bondir. Il avait toujours eu une longueur d'avance sur elle. Il avait dû rentrer à la maison pendant qu'elle prenait sa douche et aller l'attendre directement dans sa chambre. Peut-être s'attendait-il à ce qu'elle dorme dans l'une des chambres des enfants cette nuit, par précaution. Je t'ai fait peur demanda-t-il. Trop tard, Cassie réalisa qu'elle n'aurait jamais dû étouffer son cri. Il fallait qu'elle crie maintenant, autant de fois et aussi fort qu'elle le pouvait. Si elle pouvait attirer l'attention des enfants, elle serait en sécurité. Sinon, elle serait dans un sale pétrin. Mais alors qu'elle prenait son souffle, Pierre posa un doigt sur ses lèvres. Silence maintenant, intima-t-il. Tu ne connais pas les règles, il ne faut faire aucun bruit dans le jeu de ce soir. Il se leva et s'avança vers elle, qui reculait vers le lit. Les enfants sont heureux en bas, dit-il. Ils mangent leurs crêpes et m'ont dit qu'ils avaient eu une bonne journée. Ils semblent s'en sortir bien après la tragédie qu'on a vécue si récemment. Ce serait dommage de gâcher leur plaisir, alors que l'affaire inachevée que nous avons est seulement entre nous deux, non? Même si tu criais, la salle à manger est si loin qu'ils ne t'entendraient même pas. Cassie s'effondra sur le lit, les jambes tétanisées par la peur. Non, murmura t-elle. S'il vous plaît, Pierre, non. Pierre se pencha sur elle. Posant une main ferme sur son épaule, il la poussa en arrière. Elle entendit un tintement de métal et se rendit compte avec un sentiment d'irréalité qu'il défaisait sa ceinture. J'ai parlé à la police aujourd'hui, lui chuchota-t-il à l'oreille. Ils m'ont dit que malheureusement tu es toujours très soupçonné. Plusieurs questions les préoccupent. Ils m'ont demandé si tu étais digne de confiance. Que voulais-tu que je dise, Cassie Elle leva les yeux sur lui, horrifiée par ses paroles et la façon dont il la contraignait au silence. Ses yeux bruns fixaient les siens. Elle distingua une ombre de barbe sur son visage. J'ai demandé à rencontrer l'inspecteur demain. Alors tu vois, c'est à toi de décider maintenant. Vas tu jouer à mon jeu et te taire, aussi silencieuse qu'une souris, pas un bruit de ta part? Si c'est le cas, je dirai demain à la police que tu es fiable et digne de confiance, que je peux personnellement témoigner de ton caractère. Mais si tu ne joues pas le jeu, je n'hésiterai pas à dire que je crois que tu m'as déjà volé et que j'ai des preuves photographiques de toi fouinant dans ma chambre, ouvrant mes tiroirs et fouillant dans mes affaires. Quelle décision vas-tu prendre, Cassie Que vas-tu choisir Il se pencha sur elle. Ses cheveux lui chatouillaient la figure, ses doigts forts la pressaient contre le matelas. Cassie réalisa qu'il ne servait à rien de supplier ou de crier. Pierre avait envisagé tous les scénarios possibles et tout s'était échec et mat pour elle. Sauf un. Tendant la main derrière sa tête, tâtonnant sous l'oreiller, Cassie referma ses doigts sur la bombe d'acier froide du poison qu'elle avait cachée là. Son index trouva l'embout en plastique et sa prise était solide et rassurante quand elle la glissa sous elle. Elle savait quelle décision elle allait prendre et ce qu'elle allait choisir. Chapitre 29 L'inspecteur Granger s'assit avec Estelle Bray dans le petit salon éclairé par un faible soleil d'automne. Estelle possédait un modeste appartement à Senlis, à une heure de route au nord de Paris, et elle était la seconde ex maîtresse de Pierre qui avait accepté d'être interrogée par lui ce jour là. Pierre et moi avons eu une liaison pendant une bonne partie de l'année, dit elle. Elle tripotait une mèche de ses longs cheveux noirs pendant qu'elle parlait. Elle était grande, mince et très belle, et vêtu à la mode d'un jean déchiré et d'une veste en daim à franges. Continuez s'il vous plaît. L'exhorta Granger. Pour la rassurer à nouveau, il ajouta :« Ceci est tout à fait confidentiel, madame. Je prends quelques notes, mais rien n'est enregistré. » Granger avait supposé que ces entretiens seraient de la recherche contextuelle de routine, juste une case à cocher dans l'enquête. Le premier interrogatoire l'avait choqué, et celui-ci prenait la même tournure. Estelle avait été très réticente à parler. Elle n'avait accepté l'entrevue qu'après s'être fait promettre que ce serait à titre d'information uniquement, et que ce qu'elle avouerait ne serait pas révélé à Pierre. J'étais mariée et je vivais dans le coin. Mon mari voyageait beaucoup et s'absentait pendant de longues périodes. J'ai rencontré Pierre en ville. Nous étions ensemble dans une file d'attente à la banque, et il a commencé à converser avec moi. Il était charmeur, séduisant. Il m'a invité à dîner. Il m'a dit qu'il était marié, mais je l'étais aussi. Elle haussa les épaules. Granger baissa les yeux sur son calepin pour prendre une note. La plupart des gens de la région pensent qu'il est merveilleux, poursuivit Estelle. C'est un homme d'affaires éminent qui a pris soin de protéger sa réputation. Mais il y en a quelques-uns qui savent tout autre chose, qui ont vu comment il ment et ce qu'il dissimule. Quand j'ai dit à une amie qu'on se voyait, elle m'a mis en garde contre lui. J'aurais dû l'écouter mais j'ai préféré ne pas le croire. À la place, j'ai écouté ses promesses à lui. Elle enroula une mèche de cheveux autour de son doigt et regarda par la fenêtre ensoleillée les branches nues des arbres qui se balançaient dehors. Qu'est ce qu'il vous a promis? demanda Granger. Il a dit qu'il était amoureux de moi, qu'il voulait que je quitte mon mari, qu'il m'épouserait. Alors, comme une idiote, j'ai avoué à mon mari que j'avais quelqu'un d'autre, et nous nous sommes séparés. On a divorcé un an plus tard, pendant ce temps, Pierre continuait comme d'habitude, me voyait une ou deux fois par semaine. Il a fait beaucoup de compliments et plein d'autres promesses. Finalement, j'ai réalisé qu'il n'avait pas du tout l'intention de quitter sa femme. Mais j'ai aussi commencé à voir une autre facette de lui. Laquelle Granger griffonnait furieusement sur son calepin pour garder le rythme avec elle. Il aimait les choses perverses strangulation, bondage. Estelle baissa les yeux et Granger vit qu'elle avait rougi. Au début, c'était une aventure. Il faisait en sorte que ça ait l'air amusant et excitant. Puis avec le temps, il est devenu plus violent. Il refusait d'arrêter quand je lui demandais. Il y a eu plusieurs occasions où il m'a vraiment blessée. Une fois, il m'a étranglé si fort que j'ai perdu connaissance pendant un moment. Je savais que pour ma propre santé, physique et émotionnelle, je devrais en finir avec lui. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Comment ça? Granger s'assura de rester calme, malgré sa conviction que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Il était furieux que je veuille le quitter. On a eu une grosse dispute. Il m'a menacé de toutes sortes de choses. Il y avait quelques détails personnels que je lui avais racontés en toute confiance. Il a dit qu'il s'assurerait que toute la ville soit au courant. Et quand j'ai menacé de parler de lui à tout le monde, il m'a agrippé et m'a secoué, puis m'a repoussé si fort que je suis tombé. J'avais des bleus sur la mâchoire et à l'épaule. Avez-vous engagé des poursuites demanda Granger. Je suis allé à la police et ils m'ont demandé d'obtenir un rapport médical sur les blessures le plus tôt possible, afin que des accusations exactes puissent être portées. Granger hocha la tête. Je suis allé chez le médecin local, mais je n'ai appris qu'après que c'était un ami de Pierre. Après lui avoir raconté ce qui s'était passé, il m'a interrogé sur mes activités sportives, dont l'équitation et la gym. Il m'a examiné et m'a dit que mes blessures n'étaient pas assez graves et que les circonstances n'étaient pas assez concluantes pour qu'il puisse rédiger un rapport de police et que j'aurais pu aussi bien avoir ses bleus après une chute de cheval. Puis Pierre m'a téléphoné le lendemain, me menaçant que si je n'abandonnais pas les poursuites, il m'attaquerait pour diffamation et que je mentais sur tout. Elle écarta les mains. À ce moment-là, je n'étais même plus sûr d'y croire moi-même. J'ai abandonné les poursuites et j'ai déménagé. J'ai trouvé un bon emploi près d'ici comme organisatrice d'événements, alors j'ai décidé de recommencer complètement ma vie. Ce fut une expérience horrible. Il m'a montré à quel point il était toxique et qu'il ne reculait devant rien pour protéger sa soi-disant bonne réputation dans la région. Granger hocha lentement la tête. C'était une preuve éloquente. Avant de parler à ses femmes, il n'aurait jamais cru que Pierre avait un tel côté sombre en lui et qu'il était allé très loin pour protéger sa réputation. Il termina l'entretien et la remercia pour le temps qu'elle lui avait consacré. Dès qu'il quitta son appartement, il appela Bisset pour l'informer. Elle avait l'air excitée. Je viens de quitter le salon de coiffure de Margot. Alex, son styliste, a été d'une grande aide. Qu'est-ce qu'il a dit demanda Granger. Margot était malheureuse. Elle se sentait piégée. Elle voulait quitter Pierre, mais elle était terrifiée par les conséquences. Granger frissonna à ces paroles. A-t-il expliqué pourquoi elle avait l'intention de revenir au mannequinat, c'est tout ce qu'elle connaissait. Son engagement auprès de Pierre avait coupé court à une carrière prometteuse. Le problème, c'est que c'est un travail très médiatisé. Elle serait dans le domaine public et on lui poserait des questions sur son passé. Elle a dit à Alex qu'elle mourait d'envie de quitter Pierre, mais elle savait à quel point il allait mal le prendre. Elle était extrêmement déprimée. Mon entretien avec Estelle va dans le même sens, confirma Granger. Il y a autre chose, ajouta Bisset. Quoi donc? Il espérait qu'elle serait rapide. La batterie de son portable était faible, et il avait oublié son câble de chargement au poste de police. La technologie. Tu te rappelles qu'on s'est plaint qu'il n'y en avait pas? Oui. Eh bien, Margot a laissé son portable au salon de coiffure. Alex a dit qu'elle l'avait utilisé pendant son rendez vous et qu'elle l'avait oublié quand elle est partie. Il a appelé la ligne fixe le lendemain. Mais une autre femme a répondu au téléphone. Il a décidé qu'il valait mieux raccrocher et attendre que Margot le contacte, et ne savait pas qu'elle était morte à ce moment-là. Tu penses que le portable pourrait contenir des informations importantes Il y a la preuve incontestable qu'elle envisageait de reprendre sa carrière. Alex a dit qu'elle a passé quelques appels à ses collègues mannequins pendant qu'elle était dans le salon, afin de reprendre contact. Super, on fera un point sur ces appels téléphoniques. Pierre n'a pas été au courant Pas du tout, confirma Bisset. Granger raccrocha et continua à conduire. L'entretien précédent, le premier de la journée, lui avait fourni une histoire similaire. La relation avait commencé avec des fleurs, des bijoux, de la séduction et des promesses. Puis elle s'était détériorée. Le sexe pervers était devenu violent. Les promesses s'étaient transformées en menaces. La romance s'était aigrie et s'était terminée par d'autres menaces. La seule différence était que dans le premier cas, c'était Pierre qui avait rompu la relation mais les mêmes méthodes pour faire taire avaient été employées. Granger nota qu'aucune de ses maîtresses n'avait d'emploi médiatique. En tant que mannequin renommé, la décision de Margot de partir aurait pu constituer une plus grande menace pour Pierre. Granger décida qu'il avait pitié de toute femme tombée dans les griffes de Pierre. Toutes les relations semblaient finir en crève-cœur ou pire. La femme de Pierre, Diane, roulait à toute allure lorsqu'elle avait perdu le contrôle de la voiture et fait des tonneaux. Elle avait été tuée sur le coup et la voiture avait pris feu dans cet horrible accident. Granger doutait que la voiture ait été trafiquée, même si elle avait été détruite à un point tel qu'on ne pouvait en être sûr. Mais il avait découvert que deux minutes plus tôt, Pierre avait été flashé pour excès de vitesse sur la même route. Diane l'avait suivi tard dans la nuit, l'avait poursuivi sur la route nationale qui, quelques kilomètres plus tard, passait par Coubert. C'était peut-être une coïncidence si Margot résidait à Coubert à l'époque. Granger soupira de frustration. Malgré la quantité de preuves de moralité fournies, ils avaient besoin de quelque chose de plus pour procéder à une arrestation. Ce qu'ils avaient découvert aujourd'hui était presque suffisant, mais pas complètement. Il était aux trois quarts du chemin du retour et s'engageait dans les embouteillages de l'après-midi lorsque l'appel suivant de Bisset lui parvint. Granger Elle avait l'air excitée. Qu'est ce qu'il y a? Parle vite. Mon téléphone est sur le point de mourir. Je viens de rentrer. Il y a eu un nouveau développement concernant Pierre. Il faut que tu viennes vite. La femme qui travaille au château. Il ne put entendre le reste de ces paroles, car un chauffeur de poids lourd à côté de lui, coincé dans les mêmes embouteillages, klaxonna avec impatience. Qu'est ce que c'est? demanda t-il, sentant son pouls se mettre à battre la chamade. Mais il parlait à une ligne morte. Quelle femme? que s'était il passé? Granger supposa que cela devait impliquer la fille au père qu'il soupçonnait initialement. Elle lui avait semblé émotionnellement instable, sur le point de craquer. Son extrême nervosité et son vague souvenir des événements récents avaient titillé tous ses instincts. Il ignorait si elle se comportait toujours de cette façon ou si sa fragilité intérieure, qu'il avait ressentie, avait été exacerbée par un stress intense. Un stress qui aurait pu, bien sûr, avoir été causé par le fait qu'elle avait joué un rôle dans le meurtre de Margot Fabron. Avec sa batterie vide, il lui faudrait encore trente minutes frustrantes pour retourner au commissariat et découvrir le dernier rebondissement de cette affaire complexe. Une demi-heure plus tard, Granger se gara dans le parking et se précipita vers la porte d'entrée du poste de police. Saluant rapidement le planton de service, il gagna l'étage en courant. Des scénarios tournaient dans sa tête. Pour autant qu'il sache, il se pouvait qu'ils aient pris la mauvaise direction en enquêtant sur Pierre, malgré le poids des preuves dans ce sens. La porte du bureau de Bisset était ouverte. Qu'est-ce qu'elle a fait lança Granger, tout essoufflé. Elle est venue ici tout à l'heure. Elle a pris son après-midi spécialement pour venir nous voir. Granger entra et ferma la porte. Qui La fille au père Cassival il se rappela son visage effrayé, la façon dont elle avait détourné les yeux lorsqu'il avait essayé de capter son regard, et la façon dont elle l'avait fixé hâtivement en retour, les yeux écarquillés, comme si elle réalisait qu'il avait remarqué sa dérobade. Il se rappela l'habitude nerveuse qu'elle avait de creuser les cuticules de ses ongles, la façon dont elle avait modifié son histoire d'avoir quitté ou non sa chambre la nuit de la mort de Margot, elle semblait vraiment ébranlée par sa propre incapacité à se souvenir de ce qu'elle avait fait, et c'est pourquoi Granger se demandait ce qu'elle aurait pu oublier d'autre, intentionnellement ou non. Il s'attendait à ce que Bisset confirme ses soupçons, mais elle secoua la tête. Non, non, pas elle. C'est la gouvernante qui travaille à la résidence du bois qui est venue nous voir. Elle s'appelle Marnie Serrurier, et elle t'attend pour que tu l'interroges. Elle est venue au poste tout à l'heure et nous a apporté une preuve qu'elle a trouvée. Une preuve importante il capta l'excitation dans la voix de Bisset quand elle répondit Très certainement oui. Je lui ai déjà parlé. Ça change tout, Granger. Avec cette preuve et son témoignage, je crois que nous avons des motifs suffisants pour procéder à une arrestation immédiate. Chapitre 30 Cassie empoigna le spray insecticide. Tandis que Pierre resserrait son emprise sur son épaule, son doigt tremblant appuya sur l'embout. Elle allait le faire. Elle allait l'asperger de poison comme un cafard, et elle s'en fichait qu'il s'asphyxie avec les vapeurs ou même qu'elle l'aveugle. C'est alors qu'au rez-de-chaussée, le heurtoir cogna la porte, bruyamment et à plusieurs reprises. Pendant un moment, ils se figèrent tous les deux. Puis Pierre la lâcha et Cassie releva son doigt de l'embout. Il se leva hâtivement, rattachant sa ceinture en jurant et se détournant d'elle. C'était comme s'il l'avait oubliée en un instant grâce à cette interruption. Comme il n'y avait pas de personnel de service ce soir, il n'y avait personne d'autre pour ouvrir la porte, ce qui signifiait qu'elle avait obtenu un sursis. Sans doute un autre foutu journaliste, grommela t-il. Il sortit de la chambre et Cassie sauta du lit. Le choc en retour la faisait trembler de tous ses membres. Il l'avait presque piégée, et elle se sentit malade à l'idée de ce qui aurait pu arriver. Elle n'allait pas s'attarder dans la chambre. C'était l'occasion ou jamais de s'échapper en bas et de rejoindre les enfants. Elle décida de ne plus les quitter quoi qu'il arrive. Leur présence était sa seule protection maintenant. Alors qu'elle suivait Pierre en bas en conservant une distance prudente, les coups retentirent de nouveau à la porte, fort autoritaire, résonnant dans toute la maison. Papa, appela Antoinette, surgissant de la salle à manger. Il y a quelqu'un à la porte. J'arrive, lança Pierre. Retourne à ton dîner. Cassie devina qu'il ne voulait pas que les enfants entendent la tirade d'injures qu'il allait déverser sur quiconque attendait de l'autre côté de la porte. Malgré tout, Antoinette était nettement curieuse. Elle retourna vers la salle à manger, mais dès que Pierre détourna les yeux, elle s'arrêta. Qu'est ce que c'est? Pierre ouvrit la porte d'entrée en criant ces mots avec colère, et le cœur de Cassie bondit dans sa gorge quand elle vit les deux inspecteurs de police qui se tenaient là. C'était la fin. Ce que Pierre lui avait dit plus tôt n'était pas seulement des menaces. Il avait dû raconter aux inspecteurs ce qu'elle avait fait, comment elle avait fouillé sa chambre, et maintenant l'épreuve la désignait. La bouche de Cassie était si sèche qu'elle n'était pas sûre de pouvoir parler, mais elle décida qu'elle devait être complètement honnête avec les inspecteurs maintenant elle devait révéler qu'elle n'avait vraiment aucun souvenir de ce qu'elle aurait pu faire la nuit de la mort de Margot, ou si son cauchemar était enraciné dans la réalité, son imagination, ou quelque part entre les deux. Elle promettrait de coopérer pleinement avec eux et de leur raconter tout ce qui lui était arrivé dans ce château, de l'abus à la tentative d'agression. Peut-être que si elle coopérait, il lui permettrait d'emporter son portable et qu'elle pourrait au moins chercher le numéro de quelqu'un qu'elle connaissait et expliquer ce qui s'était passé. Cassie s'avança sur ses jambes tremblantes, se demandant ce qu'ils allaient lui dire et comment elle allait commencer sa confession. Puis elle capta ce que disaient les policiers et s'arrêta, l'esprit tourbillonnant, n'osant pas croire ce qui se passait. Monsieur Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Margot Fabron. Vous avez le droit de garder le silence, mais cela peut nuire à votre défense si vous ne mentionnez pas quelque chose que vous invoquerez plus tard au tribunal. Attendez. Qu'est ce que ça veut dire? Quels sont vos motifs? fulmina Pierre. Monsieur, nous vous expliquerons au poste de police. Veuillez nous suivre. L'inspecteur Granger lui saisit le bras. Je veux appeler mon avocat. Maintenant. Je n'ai rien à voir avec ça. Pierre pointa un doigt accusateur sur Cassie. C'est elle la coupable. Je vous dis la vérité. Elle allait dans ma chambre quand je n'étais pas à la maison. Elle me volait. Elle était. Cassie se prépara à la possibilité que les inspecteurs veuillent l'emmener aussi, après tout. Mais les vociférations de Pierre n'eurent aucun effet. Granger ne la regarda même pas. Vous aurez le droit de passer un appel dès que nous arriverons au commissariat, et vous pourrez demander à être représenté par un avocat. Maintenant, montez dans la voiture. Il y avait de l'acier dans la voix de l'inspecteur, et ses paroles ne toléraient aucune réplique. Jurant et menaçant, Pierre fut emmené à la voiture. Comment était ce arrivé? se demanda Cassie. Quelle était la raison de l'arrestation surprise de Pierre, et combien de temps serait il parti? Elle entendit un cri derrière elle, fit volte face, et découvrit les trois enfants près de l'escalier, qui observaient la scène avec horreur. Papa. Appela Antoinette d'une voix stridente, courant rejoindre Cassie à l'entrée. Papa, où est ce que tu vas? Pourquoi la police t'emmène? Pierre lui lança un regard noir. Retourne à l'intérieur! cria-t-il. Antoinette poussa Cassie et se précipita vers la voiture, suivie d'Ella, qui s'était mise à hurler de sa voix la plus forte. Reviens! supplia Antoinette. Cassie s'empara d'Ella et la prit dans ses bras, tandis que Bisset attrapa Antoinette par les épaules et lui fit faire demi-tour, l'entraîna à l'écart de la voiture en attente. Ton papa ne sera pas à la maison ce soir, mais tu seras en sécurité ici. Rentre maintenant, dit Bisset. Toutes deux ramenèrent dans le vestibule les enfants qui criaient, où ils rejoignirent Marc, qui suçait son pouce et regardait le spectacle les yeux écarquillés. Nous appellerons les proches parents dès notre arrivée au poste, dit Bisset, un peu essoufflé. Pourrez-vous rester avec les enfants jusqu'à l'arrivée d'un membre de la famille Oui, oui, bien sûr, acquiesça Cassie. Elle désirait ardemment demander à Bisset ce qui s'était passé, mais pas devant les enfants, et de plus elle ignorait si l'inspectrice avait le droit de lui dire. Vous avez accès à la ligne fixe du château? demanda celle ci. Oui. Cassie supposa que Pierre avait déverrouillé la porte de sa chambre, mais même s'il ne l'avait pas fait, il avait laissé ses clés sur la table du vestibule. Soyez prête à répondre à notre appel dans la prochaine demi heure. Nous vous tiendrons au courant dès que nous saurons qui viendra s'occuper des enfants et quand. J'attendrai. Bisset retourna en courant à la voiture. Cassie pensait qu'ils allaient partir aussitôt, mais elle prit une enveloppe Kraft dans la voiture et revint au trot vers elle. Elle donna l'enveloppe à Cassie. Votre passeport, dit-elle. Nous vous le retournons parce que vous n'êtes plus un témoin principal dans cette affaire. Merci de votre coopération. Mon passeport Cassie prit l'enveloppe, passant ses doigts sur le mince carnet à l'intérieur, pendant qu'une vague de soulagement l'inondait. Ce n'était pas seulement la confirmation officielle qu'elle n'était plus sur la liste des suspects, mais le fait qu'elle avait retrouvé sa liberté. Elle n'était plus prisonnière ici et pouvait choisir de partir à tout moment. Elle sentit un énorme fardeau se soulever de ses épaules, ne réalisant qu'une fois celui ci disparu à quel point cette peur l'avait écrasée. Des larmes inondèrent ses yeux et les firent cligner. Merci, merci beaucoup, chuchota-t-elle. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça signifie de l'avoir récupéré, ni combien j'avais peur sans lui. Elle voulut serrer dans ses bras, mais estima que ce n'était peut-être pas approprié. Alors elle lui serra la main à la place, et, à sa grande surprise, l'inspectrice prit chaudement sa main dans les siennes. Je suis contente qu'on ait pu vous le rendre, opina-t-elle. Cassie se souvint que l'inspectrice l'avait regardée avec curiosité après qu'elle avait échappé aux griffes de pierre le jour des funérailles, se ruant hors de la salle de musique en panique, avec ses vêtements en désordre. Elle se demanda si Bisset n'avait pas deviné ce qui s'était passé, et si c'était la raison pour laquelle elle était si compatissante maintenant. Nous vous contacterons très bientôt, affirma celle-ci d'un ton rassurant. Puis elle se détourna et se dépêcha de retourner à la voiture qui attendait. Après le départ de la police, Cassie se retrouva en charge de trois enfants hystériques. Antoinette était inondée de larmes, Cassie n'avait jamais vu l'aîné perdre autant le contrôle. Elle devina qu'avec la disparition de Margot, Antoinette avait espéré devenir la préférée de son père. Peut-être s'attendait elle à recevoir enfin l'amour et l'attention qu'elle avait toujours désiré de lui, mais qu'elle n'avait jamais reçu. Cassie savait qu'Antoinette avait tort à cet égard, mais ce n'était pas le moment de le lui dire. Pourquoi? criait elle encore et encore. Je ne sais pas pourquoi. C'est tout ce que Cassie pouvait répondre. Elle était encore sous le choc de ce qui s'était passé, incapable de croire que Pierre était vraiment parti. Elle n'arrêtait pas de penser qu'à tout moment il pourrait entrer de nouveau, qu'il appellerait son avocat en urgence et obligerait la police à faire demi tour et à le ramener ou que les inspecteurs pourraient changer d'avis et l'arrêter, elle, au final elle se surprit en train de guetter les craquements des graviers dans l'allée. Elle aurait aimé savoir quelle preuve avait servi à justifier l'arrestation de Pierre. Qu'est ce qui va nous arriver maintenant? gémit Antoinette. Une autre question à laquelle Cassie ne pouvait pas répondre. Qu'arriverait il aux enfants? En quelques jours à peine, ils avaient perdu leurs deux parents et tuteurs. Ils devaient se sentir complètement à la dérive dans ce monde, et elle ne put trouver aucun moyen de les rassurer. En fait, Cassie craignait que si Pierre était libéré sous caution, ce soit le retour aux affaires courantes au château. Elle se demanda si les conditions de la libération sous caution de Pierre allaient changer son comportement à son égard, mais elle en doutait. Pour sa propre sécurité, elle devait partir dès que possible et tourner le dos à trois enfants extrêmement traumatisés d'une famille fragmentée, qui avaient besoin d'elle plus que jamais. Elle n'avait aucune idée de ce que les prochaines heures ou les prochains jours lui apporteraient et se sentait si tendue émotionnellement qu'elle savait qu'elle n'était pas capable d'offrir le calme et le confort rationnel dont les enfants avaient besoin. Avec un effort désespéré, elle essaya de rassembler ses esprits et de devenir la personne forte et responsable qu'il leur fallait. Nous en serons plus lorsque la police nous contactera, dit-elle. Se rendant compte en les prononçant que ses paroles n'étaient pas rassurantes du tout. Elle la sanglotait de façon incontrôlable. Où est parti papa répétait-elle sans cesse, et Cassie se souvint tout à coup qu'on lui avait dit que sa mère était partie alors qu'elle était morte. Marc était maussade et agressif. Avant que Cassie ne puisse l'arrêter, il attrapa une photo encadrée de Margot sur la table du vestibule et la jeta par terre en brisant le verre. Elle n'eut pas le cœur de le châtier, et elle décida de ne rien dire à ce sujet. Montons à l'étage, proposa t-elle, espérant que le rituel de l'heure du coucher les calmerait, elle et eux. En montant, Marc donna un coup de pied dans chaque marche et cria en signe de protestation. Quand elle fut à mi chemin de l'escalier, Cassie se souvint dans un sursaut qu'elle avait laissé son passeport sur la table du vestibule. Elle l'avait posé là pour réconforter les enfants et avait oublié de le ramasser. Son objet le plus important au monde, elle ne l'avait pas gardé avec elle. Elle aussi eut envie de donner des coups de pied dans les marches, par pure frustration face à la fragmentation et à la désorganisation de ses pensées. Son épaule était contusionnée à l'endroit où Pierre l'avait serrée pour la pousser sur le lit, et elle se rappela soudain qu'elle avait respiré le parfum puissant de bois de santal de son eau de Cologne. Elle n'arrivait pas à croire qu'il était vraiment parti. Il était vraiment furieux d'avoir été arrêté, et il avait vraiment essayé de forcer la police à l'emmener à sa place. Qu'il ne revienne pas, pria t-elle. Finalement, les trois enfants se rassemblèrent devant la chambre d'Antoinette, et les pleurs des filles s'étaient suffisamment calmées pour que Cassie puisse parler. Je vous dirai ce qui se passe dès que j'en saurai plus. Elle serra fermement ses mains l'une contre l'autre pour que les enfants ne les voient pas trembler, se demandant quelle serait la meilleure façon de les consoler maintenant que tout leur monde s'était effondré. On peut dormir ensemble ce soir? demanda Antoinette. Ella et Marc approuvèrent vigoureusement. C'est une bonne idée, acquiesça Cassie. Et on peut avoir du lait et du gâteau? demanda Marc. Je dois attendre que la police appelle, mais après je t'apporterai un gâteau. Promit-elle. Soulagée qu'ils aient suggéré quelque chose de positif pour les aider à se sentir mieux, Cassie emporta l'oreiller d'Ella et quelques-unes de ses peluches dans la chambre d'Antoinette. Marc apporta le contenu de sa boîte à jouets dans la chambre et Cassie prit son matelas et sa literie au cas où ils auraient besoin de plus d'espace pour dormir. Alors qu'elle quittait leur chambre et fermait doucement la porte derrière elle, Cassie se souvint de ces mots que Marc avait marmonnés quand elle l'avait laissé sortir du placard et qu'il était passé devant elle. Il n'avait pas de sens à ce moment-là et elle était trop prise par ses propres souvenirs pour que son cerveau puisse les déchiffrer. Alors qu'elle empruntait le couloir de la chambre de Pierre pour attendre l'appel de la police, Cassie frissonna quand la réalité de ses paroles la toucha. Les mots que Marc avait prononcés étaient Tu es comme papa. Chapitre 31. De retour au commissariat, Granger s'occupa de la paperasse de l'affaire pendant que Bisset passait les coups de téléphone nécessaires. Ils étaient installés dans son bureau trop chaud, mais en cette soirée froide, Bisset ne se plaignait pas de la chaleur. Alors qu'elle remettait le combiné en place après son dernier appel, quelqu'un frappa fortement à la porte. Entra le capitaine Palomère, le commandant de la brigade, visiblement en colère. Je viens de parler à Pierre Dubois qui est en détention ici. Que se passe-t-il C'est incroyable. Veuillez expliquer vos actions. Granger échangea un regard avec Bisset avant de répondre poliment. Bonsoir, capitaine. Oui, on l'a arrêté il y a une heure. Sans ma permission Le visage du capitaine, toujours rubicon, était devenu rouge brique de colère. Il s'appuya sur le bureau, écartant ses doigts boudinés et fusilla Granger du regard. Vous n'étiez pas disponible, alors nous avons consulté le commandant du secteur. Granger gardait son calme. Il savait très bien que l'absence du capitaine avait été un coup de chance pour eux. Il était certain que si le capitaine avait été disponible, il leur aurait ordonné de ne pas arrêter Pierre. Après tout, l'œuvre d'art originale dans le bureau de Palomère lui avait été offerte par l'un des studios de Pierre, l'une des firmes de marketing qui l'utilisait. C'est de la folie! Nous arrêtons un leader de la communauté, quelqu'un qui a une réputation irréprochable. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, l'implication et la réputation de Pierre dans la communauté seront discutées pendant le procès, où les intéressés pourront prendre leurs propres décisions à ce sujet, mais cela n'a pas pu empêcher son arrestation. Je vous ordonne d'abandonner les charges contre lui. Vous avez agi de façon irresponsable et n'avez pas suivi la procédure établie. Renvoyez-le immédiatement chez lui. Bisset s'éclaircit la gorge et Granger vit qu'elle était encore plus fâchée que Palomère. Nous avons suivi la procédure à chaque étape. C'est pourquoi nous avons procédé à cette arrestation, monsieur. Ne pas arrêter ce suspect avec des preuves irréfutables contre lui aurait été un manquement à notre devoir. Montrez-moi le dossier, intima Palomère. Pierre m'a informé qu'il avait engagé une jeune fille au père étrangère il y a quelques jours et qu'il la soupçonnait de vol et d'autres crimes. Pourquoi n'a-t-elle pas été arrêtée? Il n'y avait aucune preuve contre elle, insista Bisset. Malgré les doutes de Granger au sujet de cette fille au père émotionnellement instable, il savait que Bisset était extrêmement compatissante à son égard. Après les funérailles de Margot, Bisset lui avait fait part de ses craintes que la fille au père ait été soit agressée sexuellement, soit harcelée avec une intention sexuelle par Pierre. D'après les témoignages recueillis lors des autres entrevues, Granger ne put s'empêcher de convenir que c'était probable, et il avait été soulagé de lui rendre son passeport. C'était une personne innocente qui avait été embringuée involontairement dans cette situation et qui pouvait maintenant continuer son chemin et vivre sa vie en trouvant, avec un peu de chance, un meilleur équilibre émotionnel en cours de route. Je vous en prie, jetez un coup d'œil à notre dossier, reprit Bisset. « Et dites-moi, monsieur, si c'était un pauvre type de la banlieue de Grigny, l'auriez-vous arrêté ?»« D'après les preuves, je pense que oui. Nous ne pouvons pas faire d'exception pour ceux qui sont riches ou qui ont le bras long. » Elle poussa le dossier sur le bureau. Granger était persuadé que Bisset voulait ajouter que faire une exception impliquerait de la corruption, mais elle s'en garda. « L'accord de raide politique était un équilibre délicat qu'il fallait respecter, même en sachant que l'on faisait ce qu'il fallait. » « Pierre a une équipe d'experts juridiques à sa disposition », dit-il tranquillement. « Je suis sûr qu'ils feront de leur mieux pour démonter les preuves contre lui et permettre au juge de prendre la meilleure décision. Cependant, nous devions agir conformément à notre mandat de représentant de la loi. » En tant qu'officier ayant procédé à l'arrestation, Granger savait que seul lui ou le procureur pouvaient abandonner les charges et il voyait bien la frustration évidente de Palomère face à ce fait. À titre personnel, Granger ne croyait pas que les charges seraient retenues. Il savait que Pierre engagerait les meilleurs avocats que son argent pouvait acheter et qu'il dépenserait tout ce qu'il fallait pour blanchir son nom. Mais dans un tribunal, le résultat n'est jamais certain. Quelles que soient les conclusions finales, il était persuadé que lui et Bisset avaient agi comme il se doit et il ne pouvait s'empêcher d'être satisfait car Palomère, empourpré maintenant, avait saisi le dossier et était sorti d'un pas raide du bureau. Il est loin de la retraite murmura Bisset. Deux ans, dit Granger, moins peut-être s'il a des problèmes de santé. L'hypertension peut être exacerbée par la frustration, je crois. On a pu le voir tout du long. Il lui adressa un clin d'œil conspirateur et elle sourit en retour. Cassie décida d'attendre dans le bureau de Pierre que la police appelle. Elle sortit la chaise tapissée de cuir et, perchée sur son rebord, elle réfléchit à ce que Marc avait dit tu es comme papa. Ces paroles avaient été un choc pour elle, mais elle avait fait réfléchir à la façon dont les enfants avaient réagi après qu'elle avait perdu tout contrôle. Au lieu d'être contrarié par son comportement, comme le serait un enfant normal, ils s'étaient soudainement calmés, avaient réfréné leur indiscipline et adopté un profil bas, comme s'ils se préparaient à supporter tout ce qui pourrait arriver. Peut-être avait il appris ces mécanismes de survie par expérience, pour se protéger lorsqu'une situation devenait violente et dégénérait en une spirale incontrôlable. D'où venait la police? De Margot? Margot n'était là que depuis un an, et de toute façon Pierre était clairement le chef de famille, et décidait de leur sort comme bon lui semblait. Cassie était convaincue que Pierre était un père violent. Elle était persuadée que ce n'était pas la première fois que les enfants subissaient des violences physiques. Il semblait y être habitué, et, en fait, c'était la seule forme de discipline qu'il paraissait comprendre. Cassie serra ses bras autour d'elle et se balança sur la chaise en songeant à ce que les enfants avaient dû endurer, à l'environnement toxique dans lequel ils avaient été élevés. Elle aurait dû se rendre compte, vu leur rébellion constante contre la discipline, de ce qu'ils essayaient de lui dire mais elle avait été trop lente, elle n'avait pas compris et avait fini par imputer leur comportement antisocial à son propre manque de compétences. Cassie sursauta quand le téléphone se mit à sonner bruyamment. Elle décrocha, soulagée que l'appel arrive plus tôt que prévu, et impatiente de savoir ce qui attendait les enfants. Elle se rendit compte qu'elle aurait dû avoir un stylo et du papier à portée de main, car elle aurait peut-être besoin de prendre des notes. Elle ouvrit le tiroir du bureau et le fouilla pendant qu'elle répondait, faisant de son mieux pour paraître calme et professionnel. Allô Cassie à l'appareil Il y eut une courte pause. Bébé, je croyais que tu n'avais pas le droit de répondre au téléphone ou de passer des appels. Le ton de Zane réussit à combiner douleur, accusation et triomphe. Zane Cassie était trop sidéré pour faire plus que bégayer son nom, ce qui lui donna tout l'encouragement dont il avait besoin pour continuer. J'ai pensé que tu mettais un vent. Je veux dire, ça n'existe pas de ne pas être autorisé à répondre aux appels. C'était une excuse ridicule. Je n'y ai jamais cru un seul instant. Mais de toute façon, je voulais t'en dire plus sur ce travail. Ils sont impatients de t'interviewer même par Skype pour que tu puisses le faire d'où tu es. Si tu peux envoyer ton CV par email, ils y jetteront un coup d'œil en attendant. Et bien sûr, tu pourras rester chez moi quand tu reviendras. Je ne suis pas rancunier malgré la façon dont tu m'as traité. Je serai heureux de t'aider à te remettre sur pied. Alors, tu veux que je t'arrange ça Cassie était tellement en colère qu'elle se retrouva debout en un clin d'œil. Ce qu'elle voulait dire n'aurait pas bien sonné en restant assise. Elle planta ses pieds sur le carrelage et fixa le mur opposé pendant qu'elle parlait. Deux, trois petites choses. Attaqua-t-elle, ravie d'entendre à quel point sa voix était posée. Le comportement inacceptable de Zane ne l'avait pas poussée à bout, n'avait pas été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Au contraire, elle se sentait assez forte pour se défendre et assez en colère pour dire enfin à Zane ce qu'elle pensait exactement de lui. « Tout d'abord, comment oses-tu douter de ce que j'ai dit De quel droit m'accuses-tu de mentir Parce que c'est exactement ce que tu as fait et ce n'est pas la première fois non plus que tu le fais. » Tu t'en rends compte, au moins? As tu la moindre idée de ce que ça fait d'être accusé injustement d'être une menteuse? Mais c'est comme ça que tu as mené toute notre relation. Tu m'as fait craquer à maintes reprises avec ce genre d'agression émotionnelle merdique, et je ne le supporterai plus. Parce que c'est ce que tu es, Zane, tu es un agresseur, tout comme l'était mon père. Je l'ai choisi à nouveau quand je t'ai rencontré. Bébé, je ne suis pas comme ça. Je plaisantais en disant ça. Je ne parlais pas sérieusement. S'il te plaît, tu m'as mal compris et maintenant tu m'as mis sur la défensive. Je. Zane avait l'air outré, mais Cassie ne lui donna pas l'occasion de poursuivre. Deuxièmement, tu t'en fous de moi. Je t'ai dit que j'aurais des ennuis si tu m'appelais, mais t'en as rien à foutre. Tu es égoïste, arrogant, tu te crois tout permis. Tu fais ce que tu veux et tu te moques des implications pour les autres. Quand je l'ai compris, ça m'a ouvert les yeux sur qui tu es vraiment. Je suis sortie avec toi parce que je croyais que tu tenais à moi. D'abord tu m'as maltraité sur le plan émotionnel, puis physiquement. Finalement, tu viens de me montrer que tu t'en fous si j'ai des ennuis avec mon employeur, et qu'en fait tu ferais tout pour que j'en aie, car ça convient parfaitement à ton plan tordu pour me récupérer et pouvoir me contrôler une fois de plus. C'est quoi cette connerie? J'ai dû supporter ça pendant les pires mois de ma vie, et la seule chose pour laquelle je suis reconnaissante, c'est que ça m'a montré qui tu étais réellement, et que j'ai réussi à m'éloigner de toi. Elle criait maintenant. Criait après le mur de colère, empoignant le téléphone de toutes ses forces. Bébé, je suis désolé. Ce n'est pas mon intention. C'était urgent parce que les inscriptions ferment demain et je voulais que tu aies une chance. Zane avait l'air paniqué, mais une fois de plus, Cassie passa outre ses protestations. Troisièmement, Zane, c'est moi qui dois te pardonner. Je suis parti parce que tu m'as frappé, et la seule raison pour laquelle je ne t'ai pas dit plus tôt quel acte dégoûtant et lâche c'était, c'est parce que j'avais trop peur de toi. « Ça te plaît ça C'est amusant pour toi d'être dans une relation où l'autre essaie tout le temps de gérer ton comportement horrible, inacceptable, violent et antisocial ?»« Tu te sens grand et fort de savoir à quel point tu es un agresseur ?»« Tu as hâte de rendre ta prochaine copine aussi heureuse que tu m'as rendue ?»« Je suis sûre que tu l'es, et tout ce que je peux dire, c'est que, qui qu'elle soit, j'ai pitié d'elle. » Cassie baissa le ton avec effort. Même si les enfants étaient dans la chambre la plus éloignée, ils pourraient quand même l'entendre si elle continuait à hurler sa rage. J'ai pris des photos de ce bleu et j'ai toujours ces photos dans mon téléphone. Je serai ravie d'aller à la police quand je serai de retour aux États-Unis et de porter plainte pour harcèlement et violence physique. Tu as déjà été arrêtée, Zayn La police n'aime pas les agresseurs qui frappent les femmes. Je crois qu'ils leur donnent du fil à retordre. Bébé, je t'en prie, bredouilla je ne veux pas te contredire, je suis prêt à accepter ce que tu dis, mais ce n'est pas vrai pour ce bleu. S'il te plaît, écoute-moi. Je m'en souviens mieux que toi parce que tu avais trop bu. Je te l'ai déjà dit et je te promets que ma version ne changera pas parce que c'est la vérité. On s'est disputé, mais je ne t'ai pas frappé. J'ai essayé de t'éviter de percuter une voiture. Les bleus venaient de là. Tu aurais été renversé à coup sûr. Oui, j'ai fait plein de conneries, je t'ai donné du fil à retordre, je n'étais pas le petit ami parfait. Tout ça, je suis prêt à l'admettre. Mais je ne t'aurais jamais frappé, c'est vrai. Tu as créé ça dans ton propre esprit. Le doute vacilla en Cassie, mais elle se rappela qu'elle devait être forte. Elle n'allait pas tomber dans le piège ni croire à la réalité alternative qu'il essayait de lui décrire. Pas cette fois. Je sais ce qui s'est passé. J'étais là. On n'oublie pas quand on se fait frapper. Alors ne m'appelle plus jamais, plus jamais de ta vie, ou je reviendrai aux États-Unis juste pour porter plainte contre toi. S'il te plaît, crois ce que je te dis, bébé. S'il te plaît, ne. La voix de Zeyn était étranglée par l'attention. Cassie ne perdit pas plus de temps à écouter. Elle pressa le bouton de déconnexion aussi fort qu'elle le put et reposa le téléphone. Elle tremblait encore de rage, mais elle se sentait triomphante d'avoir enfin dit ce qu'elle pensait à Zeyn, intégralement et sans crainte. Pourquoi lui avait-il fallu si longtemps Cassie se reprocha de ne pas avoir eu le courage de le faire plus tôt après tout c'était parce qu'elle avait besoin d'échapper à zeyn qu'elle avait atterri ici elle aurait pu s'éviter tant de stress si elle avait réussi à lui tenir tête avant de partir alors que le téléphone sonnait de nouveau cassie se rendit compte avec stupéfaction qu'elle n'aurait pas pu le faire plus tôt car les expériences qu'elle avait vécues ici en france lui avaient donné la force qu'il lui fallait pour affronter Zayn. Chapitre 32 Cassie se rassit et prit une grande inspiration pour évacuer sa rage avant de décrocher. Elle se dit qu'il y avait une petite chance que ce soit Zeyn qui rappelle, mais d'après le ton de sa voix à la fin de leur conversation, elle en doutait. La voix au bout du fil lui était inconnue. C'était une voix de femme agréable, bien qu'un peu stressée. Allô, c'est la fille au père s'enquit-elle. Oui, je suis Cassie et je m'occupe des enfants. Je suis contente que vous soyez là. Je m'appelle Joséphine et je suis la sœur de Diane, la défunte épouse de Pierre. Je suis heureuse de vous avoir au téléphone, répondit Cassie, soulagée de ne pas avoir affaire à un parent direct de Pierre. Après son arrestation, sa famille devait être furieuse. J'ai dit à la police que j'aimerais vous appeler moi-même. Je suis choquée par cette nouvelle et je suis sûre que vous devez l'être aussi. J'arrive à Paris immédiatement pour être avec les enfants. Je viens de Bordeaux, mais je suis en route pour la gare. Il y a un train qui part dans vingt minutes et j'espère être à l'heure. Donc vous pouvez prévoir mon arrivée vers vingt et une heures. C'est génial, se réjouit Cassie. Voulez-vous que je le dise aux enfants Doivent-ils attendre Ils doivent être épuisés. C'est à eux de choisir, mais faites-leur savoir que tante Joséphine est en route et qu'ils m'ont manqué. Je n'y manquerai pas, dit Cassie. Elle raccrocha heureuse qu'un membre de la famille arrive ce soir et réconfortée que Joséphine est appelée personnellement plutôt que de laisser la police l'appeler de sa part. En repensant à ce qu'avait dit Joséphine, Cassie se rendit compte qu'elle n'avait manifestement pas assisté aux funérailles de Margot. Ses paroles laissaient entendre qu'elle n'avait pas vu les enfants depuis un moment. Cassie regagna le couloir pour annoncer la nouvelle aux enfants. Ils étaient tous blottis dans le lit d'Antoinette qui leur lisait une histoire. Elle a sucé son pouce et Marc semblait presque endormi. « Votre tante Joséphine arrive dans la soirée, » dit-elle. « Elle, elle m'a demandé de vous dire que vous lui avez manqué. » Elle se demandait comment les enfants réagiraient, mais elle fut surprise par le cri de joie d'Antoinette. « Hourra Tante Joséphine, nous l'aimons tellement Marc, réveille-toi Tante Joséphine arrive ce soir pour s'occuper de nous Sautant du lit, Antoinette courut vers Cassie et la serra dans ses bras. Merci de nous l'avoir dit C'est notre tante préférée cria Marc en sautant sur le lit. Une aile à rayonnante se joignit au groupe. Antoinette fit une grimace à Marc. C'est notre seule tante, crétin, mais elle aime plaisanter avec nous en disant qu'elle est notre tante préférée. Elle est si gentille avec nous. Cassie, elle est vraiment gentille et affectueuse. Nous allons parfois en vacances chez elle, c'est trop beau elle a une ferme tout près de la mer. Il y a des animaux à la ferme, dit Marc entre deux sauts. Elle a des moutons, des vaches et des chevaux. Et des poneys. J'ai monté un poney la dernière fois que j'y suis allée, ajouta Ella. Tu crois que nos cousins vont venir aussi demanda Marc. Je les aime beaucoup. Ils s'appellent Thomas et Nicolas, et Nicolas a le même âge que moi. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle voyage seule, dit Cassie. Quand sera-t-elle là demanda Antoinette avec anxiété. Elle a dit à vingt et une heures. Nous attendons, décida Antoinette. Je vous appellerai dès qu'elle arrivera, promit Cassie. Merci beaucoup, Cassie. Antoinette l'embrassa de nouveau, serrant ses bras autour d'elle, et, à la surprise de Cassie, Ella et Marc l'embrassèrent et la remercièrent. Elle les serra dans ses bras en reniflant, étonnée de voir à quel point cette démonstration de gratitude l'avait émue. Je vous aime tellement, dit elle aux enfants. Je suis contente que votre tante préférée soit bientôt là. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui soit vraiment gentil avec vous. Cassie n'arrivait pas à croire à quel point l'atmosphère de la pièce avait changé après qu'elle eut annoncé cette nouvelle. Les enfants étaient heureux et positifs maintenant, aussi excités et impatients que si les vacances d'été approchaient à grands pas. Cassie se demanda si tante Joséphine leur rappelait leur mère, si c'était en partie pour cette raison qu'ils avaient hâte d'être sous son aile du moins pour le moment, parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer à long terme. Elle descendit au rez de-chaussée pour laver la vaisselle du dîner, ranger la salle à manger et trouver quelques collations pour les enfants. Elle nota mentalement de ranger son passeport en lieu sûr et de ramasser la photo que Marc avait jetée par terre. Le verre s'était fêlé mais n'avait pas éclaté. Si elle n'était pas trop abîmée, elle espérait pouvoir la récupérer. Quand Cassie arriva dans le vestibule, elle vit que la photo était à sa place. La fissure dans le verre avait été rajustée, de sorte qu'elle était presque invisible. L'enveloppe avec son passeport à l'intérieur avait été posée proprement sur le coin de la table. Elle la mit dans sa poche, qu'elle pas se demandant qui travaillait ce soir. Elle supposa qu'elle était la seule ici avec les enfants et vérifia que la porte d'entrée était verrouillée, au cas où. En passant dans la salle à manger, elle s'aperçut que la table avait été débarrassée. Quelqu'un l'aidait vraiment. Curieuse de voir si la personne qui avait fait ça était encore en train de ranger, elle se dirigea vers la cuisine. Quand elle entra, elle vit Marnie balayer le sol de la cuisine. Marnie sursauta si fort en découvrant Cassie qu'elle lâcha le balai qui tomba bruyamment par terre. Salut dit Cassie, surprise. Je croyais que tu avais ton après midi de congé, mais merci beaucoup pour ton aide. Puis elle regarda Marny de plus près. Elle était blanche comme un cachet d'aspirine. Est ce que ça va? demanda t-elle. Pierre est parti? Dis moi qu'il est parti, Cassie. Il a été arrêté. La police est arrivée vers cinq heures et demie. Pourquoi? tu étais au courant? Elle avait l'impression que son cerveau commençait à comprendre la raison du comportement étrange de Marny. J'étais au courant. Confirma Marny, elle parlait à voix basse et Cassi fit de même. C'est pour ça que tu as pris ton après-midi Je pensais que tu étais à un entretien d'embauche, je me trompais Marny hocha la tête. J'étais au commissariat. Pourquoi Cassie étudia de nouveau son visage tendu et effrayé. Je pense que tu devrais t'asseoir et me dire ce qui s'est passé. Je peux te faire du thé. Cassie mit la bouilloire en marche et prit des tasses et des sachets de thé dans le placard où elle les avait vus lorsqu'elle cherchait des ingrédients pour le dîner. Il y avait une bouteille de lait dans le réfrigérateur. Elle la sortit en pensant que Marnie, soucieuse des détails, aurait versé le lait dans un petit pot et aurait tout mis sur un plateau. Marnie s'assit à la table de la cuisine. Elle baissa la tête et laissa échapper un grand soupir, tête baissée sur ses mains. J'avais tellement peur qu'il ne l'arrête pas. Qu'il découvre où j'étais allée et que j'ai plus d'ennuis qu'on ne pourrait l'imaginer. Je sais que ça peut encore arriver. Parce que oui, c'est à cause de moi que Pierre a été arrêté aujourd'hui. Cassie la regardait fixement. Il lui fallut quelques instants pour digérer ce qu'elle disait. La surprise et le soulagement se poursuivaient dans son esprit. « Qu'est-ce que tu as fait » demanda-t-elle. Elle versa le thé et s'assit à côté de Marnie. « J'ai vidé la poubelle ce matin, celle-là là-bas. » Marnie montra le grand bac où les déchets compostables étaient jetés. C'est par pur hasard que je l'ai vu, parce qu'il était tout au fond du sac et couvert de saleté. C'était un portable. Un téléphone simple et ancien, pas un smartphone sophistiqué. Je ne l'avais jamais vu avant. C'est bizarre, dit Cassie, se demandant comment ce portable aurait pu incriminer Pierre. C'était juste après les funérailles. J'ai pensé qu'un invité l'avait peut-être perdu ou qu'un des enfants avait fait des siennes et l'avait jeté pour faire une blague. Cathy acquiesça, se disant que c'était de bonnes suppositions. J'ai voulu découvrir à qui il appartenait parce qu'il manquait sûrement à quelqu'un. Alors je l'ai essuyé et je l'ai allumé. Il restait encore un peu de batterie. J'ai vérifié la liste des appels récents et les contacts. Il n'y avait aucun contact. Ce téléphone n'avait passé que quelques appels, tous au même numéro. J'ai donc pris le téléphone et j'ai pris la route jusqu'à l'autre bout du vignoble, où l'on peut avoir du réseau par beau temps. Là j'ai appelé le numéro. Que s'est il passé ensuite? Une femme a répondu presque aussitôt, dit Marny, tenant sa tasse entre ses mains en coupe. Cassie la regarda fixement, retenant son souffle dans l'attente de ce que Marny allait dire. La femme a dit. Pierre, tout va bien, je croyais que tu avais jeté ce téléphone. Cassie dévisagea Marnie horrifiée, et pendant un moment, les mots lui manquèrent. Chapitre 33. Cassie était abasourdie par la tournure qu'avaient pris les événements. Les paroles compromettantes de cette femme mystérieuse offraient une perspective complètement différente. Le fait que Pierre l'appelait sur un téléphone secret, peu après la mort de Margot, était une bombe. Qu'as tu fait quand tu l'as entendu parler? demanda t-elle à Marny. Cassie posa la main sur la table, rassurée par l'impression de solidité du bois qui lui remettait les pieds sur terre quand tout le reste était étourdissant d'incertitude. J'ai mis fin à l'appel, j'ai tout de suite su que si Pierre découvrait que j'avais trouvé le téléphone, j'aurais de sérieux problèmes. J'ai été tentée de le jeter à la poubelle et de faire comme si je ne l'avais jamais trouvé. Puis je me suis dit, est-ce que je veux faire ce qui est facile ou est-ce que je veux faire ce qui est juste Et tu as choisi ce qui était juste. Cassie pouvait imaginer à quel point cette décision avait dû être difficile. En effet, je savais que je devais la porter à la police, mais en même temps je ne pouvais pas m'enfuir avec. Je suis donc allé voir Pierre immédiatement, priant pour que cette femme ne l'ait pas déjà rappelé. Je ne pense pas qu'elle l'aurait fait, dit Cassie. Peut-être qu'elle a réalisé qu'elle avait fait une erreur et qu'elle a préféré se taire. Oui, je pense que c'est ce qui a dû se passer. Bref, j'ai demandé à Pierre de prendre mon après midi. J'ai dit que j'avais quelque course urgente à faire. Il me l'a accordé, et je suis allé directement au poste de police. J'ai dû attendre un peu que les inspecteurs reviennent, car ils étaient sortis tous les deux. À leur retour, ils ont examiné le téléphone et m'ont interrogé. C'est là que j'ai découvert que l'épreuve n'était pas seulement incriminante, mais qu'elle justifiait une arrestation. Cassie remplit de thé la tasse de marnie et attendit qu'elle continue. Ils ont dit que des appels avaient été passés à Hélène, la maîtresse de Pierre, à qui il avait rendu visite la nuit de la mort de Margot. Le timing était important. Le téléphone n'avait servi que cinq fois. Des appels ont été passés le matin avant la mort de Margot, plus tard dans l'après-midi et tard dans la soirée. Puis deux autres le lendemain matin. Les pièces du puzzle se mettaient en place chez Cassie. Ils ont donc dû utiliser un autre téléphone pour communiquer pendant ce court laps de temps. Puis Pierre l'a jeté. Oui, Pierre n'a jamais mentionné ce téléphone à la police, et ils ont dit que le téléphone et les appels indiquaient une préméditation. Je suis si fière de toi, Marnie, dit Cassie. Ce que tu as fait était très courageux. J'étais morte d'inquiétude. Pierre a un caractère violent, et j'en ai vu les répercussions. Je ne vais plus rester ici. Tu ne pourrais pas, après avoir fait ça. L'autre offre d'emploi a t-elle été confirmée? Oui, mais je quitte la France. L'entreprise qui m'emploie est basée à Londres, et ils ont deux hôtels là bas. J'ai demandé si je pouvais travailler dans l'un d'eux, et ils ont accepté. Je ne veux pas être à Paris, ni même à la campagne, avec le procès de Pierre en cours. C'est un homme vindicatif, et son influence est considérable. Je comprends. Répondit sobrement Cassie. Les paroles de Marnie lui firent songer à sa propre situation et aux menaces que Pierre lui avait adressées. Elle se sentit plus mal à l'aise que jamais au sujet de sa situation difficile et se demanda ce qu'elle dirait à Joséphine, à quel point elle devrait expliquer. Après qu'elle et Marnie se soient souhaité bonne nuit et aient échangé leur numéro de téléphone, Cassie apporta du lait au chocolat et des biscuits aux enfants puis attendit dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle entende le taxi arriver. Elle se dépêcha d'ouvrir la porte d'entrée pour accueillir Joséphine. Une femme svelte aux cheveux noirs sortit du taxi, marcha droit sur Cassie et lui donna une chaleureuse accolade. Ma pauvre petite, dit elle, quelle terrible situation à affronter. Les enfants vont bien? Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Ils vont bien. Ils étaient très bouleversés, mais ils ont bien géré la situation et se sont soutenus mutuellement. Et ils ont bien repris courage quand ils ont su que vous veniez. Ils mangent des biscuits et du lait au lit maintenant. Mais ce n'était plus le cas. Cassie entendit des pas de course dans l'escalier et vit que Marc menait la charge jusqu'à la porte d'entrée, Antoinette et elle là dans son sillage. Tante Joséphine est là cria-t-il. Posant son sac par terre à la hâte, Joséphine prit les trois enfants dans ses bras et les serra bien fort. C'est si merveilleux de vous voir tous, comme vous avez grandi. Cassie m'a dit combien vous avez été courageux. Je suis fière de vous tous. Cassie remarqua que Joséphine pleurait. Elle sortit un mouchoir de sa poche et s'essuya les yeux avant de se retourner vers les enfants. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, tante Joséphine demanda Antoinette. Tout de suite on va tous aller se coucher et se reposer. Et demain Ella sautillait avec impatience. Demain, on a décidé que vous viendrez avec moi vivre à la ferme, à Bordeaux. Vraiment demanda Antoinette, qui avait aussi les larmes aux yeux. Oui, dit Joséphine d'une voix douce. Marc et Ella criaient de joie, dansant autour de Joséphine, tandis qu'Antoinette entourait sa tante de ses bras et pleurait plus fort. Je suis heureuse, je le suis vraiment. Dit-elle lorsqu'elle put parler. Je pleure de joie. Joséphine lui caressa les cheveux. C'est toujours bon de pleurer, qu'on soit heureux ou triste. Mais je suis contente que vous soyez heureux de venir vivre avec moi. J'ai parlé à votre papa, il vous embrasse et vous dit qu'il va bien. Il est excité à l'idée que vous allez vivre à la ferme. Allez, petite marmotte, vous avez besoin de vous reposer. On a beaucoup à faire demain. On doit faire tous vos bagages et préparer votre voyage en train jusqu'à Bordeaux. Cassie suivit la famille à l'étage et aida Joséphine à mettre les enfants au lit. Non pas qu'elle eût vraiment besoin d'aide, remarqua Cassie. Les enfants l'adoraient sincèrement et se comportaient au mieux. En quelques minutes seulement, ils furent tous au lit. Allons discuter un peu en bas, suggéra Joséphine à Cassie. Elles se rendirent à la salle à manger où Joséphine leur versa chacune un verre de Bordeaux. Je trouve qu'un verre de vin le soir m'aide à bien dormir. Confia-t-elle. Et après cette folle après-midi, j'ai besoin de quelque chose pour me calmer. Je suis sûre que vous aussi. Merci, dit Cassie. Elle sirota le riche bordeaux rouge en pensant à la chance qu'avaient les enfants. Joséphine était si gentille et amicale, et elle avait les pieds sur terre. Joséphine prit une grande inspiration. Je ne pourrai jamais vous remercier assez d'avoir aidé à garder les enfants. Je sais à quel point ils ont dû être perturbés par tout ça. Et je suis sûre que vous n'avez pas eu la vie facile. Tout va bien, dit Cassie. Mais Joséphine secoua la tête. Les choses ont été très difficiles ces dernières années. Tout d'abord, il y a eu des problèmes entre Pierre et Diane dans leur mariage, et je sais que Diane était extrêmement malheureuse depuis longtemps. Quand elle est morte, j'ai suggéré de prendre en charge la garde des enfants, mais Pierre a refusé. Margot a emménagé presque immédiatement, et il m'a dit qu'elle s'en sortirait parfaitement et que mon intervention était inutile. Ça a dû être blessant, dit Cassie. Joséphine inclina son verre et fit doucement tournoyer le vin rouge. Je n'ai pas été la bienvenue au château pendant longtemps. Pierre et moi ne nous sommes jamais entendus, et notre relation s'est détériorée au fil des ans, malgré les efforts de Diane pour arranger les choses. Elle et Pierre se battaient si fort, si souvent, que ça n'a fait qu'aggraver le conflit entre nous tous. J'ai fini par rester à l'écart et j'ai invité les enfants à venir me voir pendant les vacances. Puis quand Margot a emménagé, Pierre a refusé ça également. Les enfants et moi ne nous sommes pas vus depuis plus d'un an. Vous avez dû leur manquer terriblement, dit Cassie. Je crois que oui. Leur vie ici n'était pas heureuse, et je doute qu'elle se soit améliorée au cours de l'année passée, convint Joséphine. Elle prit une autre gorgée de vin. La police a dit quand ils m'ont appelé qu'il y avait des preuves irréfutables contre lui. J'ai demandé si je pouvais parler à Pierre, et, à ma grande surprise, ils lui ont permis de m'appeler pendant que j'étais dans le train. Il fulminait, jurait, et blâmait tout le monde sauf lui même. Il a dit qu'il avait pris dernièrement un autre téléphone pour appeler sa maîtresse après que Margot s'est mise à avoir des soupçons. Il s'en est débarrassé après sa mort parce qu'il ne voulait pas que la police le sache, et qu'à cause de ça il soupçonne une collusion et une préméditation. Ça ne sent pas bon, n'est ce pas? Il n'arrêtait pas de crier qu'il était innocent et qu'il allait se blanchir mais même lui a reconnu que ce ne serait peut-être pas facile ni rapide. Alors je lui ai demandé à nouveau si je pouvais prendre en charge la garde des enfants. Il n'avait pas d'autre choix que d'être d'accord. Après tout, son avenir étant incertain et sa sortie de prison n'étant pas encore confirmée, il n'y a pas de place dans sa vie pour les enfants, et j'ai également fait remarquer qu'il souffrirait des rumeurs et des accusations qui circuleront dans le voisinage. Oui, sans aucun doute, répondit Cassie, se demandant combien de soi-disant amis de Pierre changeraient de camp quand la nouvelle serait diffusée. Nous avons convenu qu'il me cède officiellement la garde des enfants. Je suis plus qu'heureuse de le faire. Mon mari et moi adorons le temps que nous passons avec eux et ils s'entendent bien avec nos deux garçons. C'est la meilleure chose à faire pour eux. Je suis tellement soulagée que les choses se passent ainsi, opina Cassie. Je suis sûre que vous vous demandez où cela vous mène, supposa Joséphine. Cassie réalisa à son grand soulagement qu'à présent que les enfants allaient commencer une nouvelle vie, il n'y aurait plus de place pour elle au château. Elle hocha la tête poliment, serrant fort les mains pendant que Joséphine continuait. Donnez-moi vos coordonnées bancaires. Demain, à la première heure, je vous virerai le montant qui vous est dû, ainsi qu'un bonus pour le stress et les désagréments que vous avez dû endurer. Merci beaucoup, dit Cassie. J'ai le contrat enregistré dans mon téléphone, donc je peux vérifier mon salaire de novembre. Joséphine secoua fermement la tête. Mon mari et moi sommes tous deux d'accord que dans ce cas, votre salaire annuel total vous est dû, avec une prime en guise de remerciement. En retour, tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas parler de ce qui s'est passé, ni à la presse, ni à quiconque pourrait être curieux. Pour le bien des enfants, nous aimerions limiter autant que possible les informations nuisibles. Je comprends, acquiesça Cassie. Je n'aurais rien dit, même sans la prime et le plein salaire, ce qui est extrêmement gentil de votre part. Joséphine posa son verre. Merci, merci beaucoup. Si vous ou les enfants avez besoin de moi, je serai dans la première chambre à droite, dans l'aile des invités. Dormez bien. Cassie la regarda monter, l'esprit tourbillonnant. Elle n'arrivait pas à croire la surprise de la fin de cette journée épouvantable. Elle se rendit compte à quel point elle s'était inquiétée pour les enfants, coincés dans cette situation dysfonctionnelle et sans issue. Maintenant, ils avaient une échappatoire. Ils avaient une tante qui les aimait, un endroit sûr où aller, et une vie familiale stable devant eux, et elle était soulagée outre mesure à ce sujet. Et sa situation avait fait volte face aussi. Après avoir vécu dans la peur sous un nuage de suspicion, elle était libre de partir et avait de l'argent en poche, bien plus que ce à quoi elle s'attendait. Elle posa son verre vide et se dirigea vers la porte d'entrée pour la fermer à clef pour la nuit, mais avant de le faire, elle sortit. Elle contempla un instant l'imposante façade de pierre du château, la pierre pâle semblant luire dans l'obscurité. Une brise fraîche la fit frissonner. Elle n'était pas entièrement libre. Bien que Joséphine ne l'ait pas dit directement, elle était certaine que Pierre avait mentionné son nom lors de ses fulminations. Elle était certaine qu'il donnerait suite à ses menaces de la faire arrêter pour vol, ce qui pourrait l'amener à être accusée d'autres crimes. Si Marnie quittait le pays, elle devrait peut-être faire de même, du moins jusqu'à la fin de son procès. Après tout, Pierre était un homme riche et vindicatif dont l'influence avait une grande portée, et bien que la police ait cru à son histoire et l'ait laissé partir, Cassie craignait que d'autres ne le croient pas. Et qui savait quand Pierre pourrait être libéré sous caution Avec tout son pouvoir, il pourrait peut-être sortir dès demain et revenir au château. Une vague de frissons l'envahit. Il n'y avait pas de temps à perdre. Oui, quitter la France était exactement ce qu'elle devait faire, et elle le ferait à la première heure demain matin. Chapitre 34 La lumière du matin se répandait dans le château quand Cassie aida les enfants à porter leur sac en bas de l'escalier. Celui de Marc contenait quelques vêtements, ainsi que tous les jouets qui pouvaient éventuellement tenir dans la grande valise. Marny portait le sac d'Ella et un sac à dos de rechange, tandis que Joséphine et Antoinette roulaient l'énorme valise d'Antoinette dans le vestibule. On appelle un taxi demanda Joséphine. Non, non, laissez-moi vous conduire à la gare, insista Cassie. Marny partit chercher le SUV de pierre, le plus spacieux des véhicules disponibles, l'amena devant la maison et ouvrit toutes les portières pendant que Cassie commençait à le charger. C'était une belle journée fraîche, venteuse et claire. Le vent frais de l'automne ébouriffa les cheveux de Cassie, qui se sentait pleine d'espoir quant à ce qui l'attendait. Après avoir déposé la famille à la gare, elle ramènerait la voiture, puis ferait ses bagages et appellerait un taxi. Elle décida de retourner à la même gare et de prendre l'Eurostar pour Londres. Elle pourrait être de l'autre côté de la Manche et dans un tout nouveau pays qu'elle avait toujours voulu explorer. Marnie était également prête à partir et avait chargé ses affaires dans sa propre voiture. Cassie l'embrassa, attristée de dire au revoir à quelqu'un qui était devenu une bonne amie, même si elle espérait que si elles étaient toutes les deux à Londres, elles pourraient bientôt se revoir. Nous resterons en contact, chuchota Marnie. Mon nouveau lieu de travail a du réseau et j'adore envoyer des SMS. Bonne chance! Puis il fut temps de se rendre à la gare avec les enfants qui, excités par le voyage, chantaient faux en chœur à l'arrière de la voiture. Une fois sur place, Cassie aida Joséphine à charger un chariot avec tous les bagages et à le pousser jusqu'au quai où le train pour Bordeaux attendait déjà. Cassie regarda le train élégant et brillant et se sentit soudain perdue. Elle aurait préféré ne pas avoir à dire au revoir. Un par un, elle serra les enfants dans ses bras. Antoinette, je suis très contente pour toi. Je sais que tu vas passer des moments formidables avec Joséphine, et tu es si forte. Je te remercie. Toi aussi tu l'es, Cassie. J'étais odieuse avec toi parce que j'étais malheureuse, même si je voulais être ton amie, chuchota Antoinette. Marc se pavana devant elle et lui tendit la main. Cassie la prit et les larmes lui vinrent aux yeux quand elle découvrit que Marc lui avait donné l'un de ses précieux petits taureaux. Tu viendras nous rendre visite, Cassie demanda-t-il. Je le ferai, je te le promets. Ella s'approcha timidement et donna à Cassie un papier plié. Je t'ai fait un dessin, dit-elle. C'est un soleil, parce que quand je pense à toi, je pense au soleil. Merci de t'être occupée de nous. Cassie cligna ses yeux larmoyants en étreignant Ella. Je me souviendrai toujours de toi, lui dit-elle en souriant. Les adieux faits, la famille monta dans le train et Cassie agita frénétiquement la main, répondant à leurs signes jusqu'à ce que le train soit hors de vue. Elle remonta dans le SUV, réfléchissant à ses plans, mais en grimpant à l'intérieur, elle huma la trace d'une odeur familière qui lui fit froid dans le dos. C'était l'effluve piquant de bois de santal de l'eau de Cologne de Pierre. En le respirant, Cassie sentit sa peau se hérisser de chair de poule. Elle se rappela comment Pierre l'avait poussée sur son lit, ses doigts crochés dans son épaule, lui murmurant des menaces à l'oreille pour la forcer à se taire. D'un doigt tremblant, Cassie baissa la vitre et laissa souffler la brise, souhaitant que les souvenirs puissent s'envoler aussi facilement mais ils n'avaient jamais été aussi vifs, et elle eut l'impression de revivre l'horrible scène. Il avait été si confiant, si calculateur. Son air de triomphe devant l'impuissance de Cassie l'avait rendu malade. Dans sa terreur, elle avait occulté les détails de ce qu'il avait dit, mais maintenant ses paroles lui revenaient à flot. Il lui avait dit qu'il savait qu'elle avait été dans sa chambre et qu'il avait une preuve photographique qu'elle fouinait, fouillait et ouvrait ses tiroirs. Une preuve photographique Cassie appuya son front sur le volant, pensant à ses menaces et réalisant l'énormité de ce que ces mots signifiaient réellement. Elle ne pensait pas que c'était des menaces en l'air. La certitude dans sa voix, combinée au fait qu'il avait essentiellement décrit ses actions, indiquait une autre alternative. Pierre avait une caméra cachée dans sa chambre, et il l'avait vue dessus. Il serait impossible pour Cassie de plaider son innocence si cette caméra existait. Il ne lui restait qu'une seule chance de la trouver, et si elle y arrivait, elle devrait la détruire. Sinon, elle était certaine que Pierre donnerait suite à ses menaces et utiliserait les images pour l'incriminer dès qu'il en aurait l'occasion. Elle resta assise là, à délibérer. D'un côté, elle devrait quitter le pays avant que Pierre ne soit relâché. De l'autre, elle devrait découvrir s'il y avait de réelles preuves contre elle. Finalement, elle tourna le volant et appuya sur l'accélérateur. Quitter le pays devrait attendre. Elle devait faire un dernier voyage au château détesté. Chapitre 35 deux femmes de ménage travaillaient dans la cuisine, mais l'étage supérieur du château était désert, et Cassie n'entendit aucun bruit venant de l'aile des invités ni des chambres des enfants, tandis qu'elle se rendait dans la chambre de Pierre. Tu dois le faire, se dit elle, tu dois trouver ce qu'il y a avant qu'il ne l'utilise contre toi, parce qu'il le fera. Elle regarda autour d'elle, des papillons voltant dans son ventre, espérant que si Pierre avait un système installé, il serait facile à trouver. Elle ignorait combien de temps elle avait. Pierre aurait déjà pu informer un détective privé de ce qu'il fallait faire et où chercher. Le détective pourrait même être en route. Sa première idée, qu'il y avait une vidéosurveillance installée dans la pièce, était fausse. Il n'y avait pas de caméra visible. Des caméras cachées, alors? Cassie scruta les murs, souhaitant avoir une meilleure idée de ce à quoi pourraient ressembler les caméras ou à quelle hauteur elles devraient être placées. Faisant le tour de la pièce, les nerfs à vif, elle essaya d'aborder la situation de façon logique. La caméra, s'il y en avait une, l'aurait filmée fouillant le tiroir secret. Elle devait donc être montée sur un mur avec vue sur le lit. Se tournant vers le lit, Cassie commença à se demander si la fonction principale de la caméra était bien la sécurité ou si elle était là pour une toute autre raison. Peut-être Pierre prenait-il plaisir à filmer ses exploits pervers pour pouvoir revivre ses scènes encore et encore. Dans ce cas, les murs de chaque côté du lit massif seraient le meilleur endroit pour cacher une caméra. En regardant de près la magnifique peinture à l'huile sur le mur de droite, Cassie remarqua une tache plus foncée dans la piscine bleue nuit au centre du tableau. La lumière se réfléchissait sur elle comme sur une lentille de verre. Cassie souleva le tableau du mur, remarquant qu'il était facile à enlever et qu'il y avait deux trous dans la toile. Cassie se pencha plus près, et son cœur battit la chamade quand elle découvrit l'alcôve dans le mur. La caméra vidéo qu'elle abritait était un petit modèle à la fine pointe de la technologie. Le trou le plus grand dans la toile recevait son objectif, et l'autre trou minuscule, large comme le petit doigt, permettait l'accès au bouton enregistré. Il s'en servait pour ses exploits, dit elle à voix haute, horrifiée à cette idée. Elle se demanda si Margot le savait. Qui avait il sur cette vidéo? Eh bien, elle allait le découvrir. Elle retira avec précaution la caméra de l'alcôve. Sa batterie était à plat, mais il y en avait deux de rechange dans l'alcôve, et la seconde qu'elle essaya était encore chargée. Ce n'était donc pas une caméra de surveillance permanente. Les images seraient fonction de la durée de vie de la batterie, qui selon elle était de quelques heures tout au plus. Comment cela fonctionnait-il Assise sur le lit, Cassie déplia l'écran et alluma la caméra. Elle navigua dans le menu et trouva les vidéos stockées. Il y avait quatre films enregistrés sur la carte mémoire. Cassie commença par le quatrième et le plus ancien, et quand les images en ne peu plus claires commencèrent à défiler, elle émit un cri de surprise. Pierre s'éloignait de la caméra en souriant. Il venait sans doute de l'allumer. Et sur le lit, les yeux bandés par un ruban noir et les mains attachées dans le dos, se trouvait une femme pulpeuse à la peau de porcelaine et aux longs cheveux roux. Quand est-ce que ça a été pris se demanda Cassie à voix haute. Elle pouvait entendre l'incrédulité dans sa propre voix. Pierre avait amené une autre femme dans sa chambre. Cette rousse était-elle sa maîtresse, Hélène elle n'avait pas envie d'en voir davantage. Elle vérifia la date et fronça les sourcils d'étonnement en découvrant que cela avait été filmé il y avait à peine une semaine. Margot avait dû sortir, et Pierre avait fait entrer la rousse ici. Il avait dû en profiter pour le faire avant l'arrivée de Cassie. Après tout, avoir une fille au père en résidence signifiait une autre personne dans l'aile familiale, ce qui rendait plus difficile de faire entrer qui que ce soit clandestinement. Cassie passa à la vidéo suivante, grimaçant en revoyant l'horrible scène d'étranglement qu'elle avait espionnée à travers le trou de serrure. L'écran haute définition montrait tous les détails des luttes de Margot et, à son grand étonnement, elle réalisa que l'appareil enregistrait aussi un son très clair. Secouant la tête, elle arrêta la vidéo. Elle ne voulait plus voir ces images. La troisième vidéo était d'elle. Cassie se vit entrer, regardant nerveusement autour d'elle et procédant à la fouille de la pièce. Elle avait l'air furtive et terrifiée, et lorsqu'elle sortit l'équipement de bondage, elle fit face à la caméra qui affichait une image nette de son visage en état de choc. Elle était persuadée que Pierre en avait tiré un petit frisson et que cela lui avait certainement fourni l'information dont il avait besoin. Il aurait pu montrer ces images à la police, et elle l'aurait gravement compromise. Cassie regarda jusqu'à la fin, puis appuya fermement sur le bouton Supprimer. Quoi qu'il arrive, il n'y aurait plus de possibilité de chantage. Les preuves de son intrusion dans cette pièce avaient été effacées. La troisième vidéo supprimée, la quatrième apparut à l'écran et Cassie se crispa en la regardant. C'était Margot. Margot portait le manteau turquoise qu'elle avait à sa mort. Elle était assise sur le lit et fixait la caméra. C'est quoi ce bordel? Se murmura Cassie à elle-même. C'était la dernière vidéo de la caméra et elle avait dû être prise la nuit où Margot était morte. Elle disait quelque chose. Avec précaution, Cassie monta le son, n'osant pas respirer alors que la voix en colère de Margot résonnait dans la pièce. Espèce de salaud disait Margot en regardant le tableau, les yeux plissés. Tu croyais que je ne savais pas que cette caméra était là, hein Bien sûr que si, je ne suis pas aussi stupide que tu le penses. Je ne crois pas non plus ce que tu me dis. Tu es allé au chalet pour la nuit Oh, je ne crois pas. Tu es avec une de tes copines. Je sais tout sur elle. Tu as peut-être emmené Cassie quelque part si tu n'as pas déjà abusé d'elle. Ou peut-être que cette fois tu es allé voir Hélène. Ne fais pas semblant de ne plus la voir. Tu l'appelles toujours, j'en suis sûre. Tu es un sale menteur, Pierre, et je regrette le jour où je t'ai rencontré. À ce moment là, Margot arrêta ses divagations et se tourna vers la porte de la chambre comme si elle avait été interrompue par un bruit. Une peur bleue planta ses doigts glacés dans la colonne vertébrale de Cassie. C'était là qu'elle entrait en scène. Elle était certaine que la porte s'ouvrirait et qu'elle serait là. Des souvenirs jaillirent dans son cerveau, des fragments d'une bagarre et ce qu'avait ressenti Jackie dans son rêve quand elle l'avait poussée le cri dont elle se souvenait, aussi aigu et strident que si elle l'avait entendu tout éveillé, et le sentiment incontrôlable de sa propre colère. La frontière entre la réalité et l'imagination avait été brouillée chez Cassie, mais la caméra aurait enregistré chaque détail avec netteté. Cassie se prépara à regarder, se demandant si elle serait capable de supporter de se voir commettre un meurtre. Chapitre 36 Cassie regarda l'écran, ses mains glacées, crispées sur la caméra, craignant le pire au fil des secondes. La porte de la chambre resta fermée et elle laissa échapper une lente et tremblante expiration lorsque Margot reporta son attention vers la caméra. Margot avait dû entendre Cassie quand elle avait marché en somnambule jusqu'à la porte, mais elle n'était pas rentrée dans la chambre et cela la rendit malade de soulagement. Margot reprit sa diatribe. Je sais que tu ne me laisseras jamais partir. Ton ego démesuré ne le permettra pas. Tu ne me laisseras plus jamais réussir dans ma carrière. J'en ai marre de toi, de tes mensonges, et de ton besoin avide de tout contrôler dans ma vie. Je suis fatiguée de tout ça. Margot se leva, vacillant légèrement. Je n'ai pas envie de me battre contre toi. Alors je vais y mettre fin. Et tu sais quoi? Elle pointa fermement son doigt devant la caméra. C'est de ta faute. C'est toi le responsable. Et j'espère que tu te sens coupable d'en être responsable. Le cœur de Cassie s'enfonça dans sa gorge. Non, Margot, s'il vous plaît, non, ne le faites pas, supplia-t-elle, même si elle savait qu'il était déjà trop tard. Adieu, Pierre, dit Margot. Horrifiée, Cassie plaqua sa main sur sa bouche quand la blonde sortit de la chambre et grimpa sur une chaise du balcon. Elle vacilla sur la balustrade, titubant pendant un moment sans fin puis tomba, plongeant dans l'obscurité et disparaissant de l'écran. Oh. Non, mon Dieu, non, je n'arrive pas à le croire. Murmura Cassie. Elle posa la caméra et se frotta furieusement les yeux, pressant ses mains sur eux, souhaitant effacer de sa mémoire les saisissantes images. La fureur résignée de l'attitude de Margot et le désespoir de sa voix étaient effrayants. Margot s'était suicidée et avait filmé son acte pour se venger de Pierre. Et il ne l'avait jamais su, il n'avait pas eu l'occasion de voir les dernières images stockées dans la caméra. Il ignorait totalement l'existence de ce dernier enregistrement. Cassie écarquilla les yeux quand elle réalisa que cet enregistrement innocentait Pierre. Il prouvait sans l'ombre d'un doute que Margot s'était bien suicidée, ce qu'il avait, Pierre, de tout soupçon. Elle se rappela ce que Marnie avait dit la veille au soir Tu pourrais faire ce qui est facile ou bien faire ce qui est juste. La chose la plus facile serait de remettre cette caméra derrière le tableau et de faire comme si elle ignorait son existence. La bonne chose à faire serait de la porter à la police. Mais Cassie se demanda ce qui se passerait si elle le faisait. Pierre avait été réticent à céder les enfants à leur tante, même avec les accusations portées contre lui. S'il était innocenté, Cassie était certaine qu'il dénoncerait cet accord et qu'il reprendrait sa vie. L'avenir heureux des enfants avec Joséphine serait écourté et ils retournerait au château. Hélène s'installerait et le cycle toxique se répéterait. Pour Pierre, c'était une question de pouvoir. Les enfants lui donnaient le statut de père de famille au sein de la communauté, et leur présence à la maison l'aiderait à rebâtir sa réputation après avoir été injustement accusé du crime. Cassie avait bien vu à quel point tous trois étaient traumatisés, abîmés. C'était leur seule chance d'avoir une vie meilleure dans un foyer plus stable avec une tante qui les aimait tendrement. Elles pouvaient faire ce qui était facile ou ce qui était juste. Mais il y avait peut-être un troisième choix, le plus difficile de tous, qui serait de faire ce qui était le mieux pour tout le monde effacer cet enregistrement, le supprimer de la caméra et retirer la carte mémoire pour qu'il n'y ait aucune récupération possible, jeter la carte ailleurs, la déposer dans une poubelle d'un centre commercial ou la jeter dans les toilettes pour qu'elle disparaisse à jamais et qu'on n'en retrouve aucune trace. Cassie se rendit compte qu'elle perdait le souffle à considérer les implications. Si elle faisait ça, Pierre devrait faire face à ses accusations, même s'il était innocent. Il pourrait bien être reconnu coupable d'un crime qu'il n'avait jamais commis. Il pourrait passer un long moment en prison, la perpétuité au pire, et il aurait confié ses enfants aux soins d'une autre personne et Cassie commettrait elle-même un crime en détruisant ses preuves. Cela pourrait certainement la conduire en prison. Elle serra les lèvres en se rappelant comment Pierre l'avait presque violée, comment il l'avait menacée et agressée, la peur impuissante qu'elle avait ressentie en sa présence, sachant qu'il pouvait faire comme bon lui semblait. Elle songea aux menaces qu'il avait faites aux autres et à la peur qu'elles avaient de lui, et comment même les gens de la communauté avaient peur de dire du mal de lui alors qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire la façon dont le personnel du château tentait désespérément d'être invisible autour de lui, parce qu'il se sentait autorisé à faire ce qu'il voulait et à prendre ce qu'il voulait. Comment il avait trompé Margot et l'avait rendue si malheureuse qu'elle ne voyait plus d'issue. Il l'avait détruite au plan émotionnel, et elle s'était suicidée, ne voyant aucun autre moyen de s'échapper. Elle avait voulu que Pierre paye pour ce qu'il avait fait, mais l'ironie de ses actions était que s'il était au courant de cet enregistrement, il s'en tirerait à bon compte. Ce n'était pas l'intention de Margot, et ce n'était pas juste non plus. Puis, plus important encore, il y avait les enfants à prendre en considération. Ils avaient certainement subi des abus de sa part. Ils avaient été élevés dans un environnement toxique qui était plus une question de contrôle que d'amour. Maintenant, ils avaient la chance de se refaire une nouvelle vie, prendre un tout nouveau départ. Ils pouvaient guérir, aller de l'avant, apprendre à fonctionner comme des membres normaux et heureux de la famille. Cassie devrait assumer la responsabilité et porter la culpabilité de cette décision pour le restant de sa vie. Pourrait elle le faire? Elle hésita un moment, s'interrogeant sur les circonstances qui l'avaient conduite à ces images non découvertes qui avaient le pouvoir de changer le cours de tant de vie de tant de façons. Elle réfléchit à l'imagination et à la réalité, et à la façon dont leurs frontières étaient devenues floues dans son monde. Il est temps de prendre une décision. Dit-elle à voix haute, et elle fut tout à coup certaine de la bonne ligne de conduite à adopter. Rapidement, avant d'en débattre encore avec elle-même, elle appuya sur le bouton Supprimer et effaça le film de la caméra. Avec cette seule touche, les derniers mots de Margot furent supprimés à jamais, ses secrets enfermés dans le passé. Cassie trouva la carte mémoire et la retira, la glissa au fond de sa poche. Elle la jetterait là où on ne la retrouverait jamais quand elle serait loin d'ici. Elle replaça la caméra dans l'alcôve, remit le tableau à sa place, et lissa le dessus de lit à l'endroit où elle s'était assise, comme si elle n'avait simplement jamais été là. Puis elle sortit de la pièce. Elle craignait d'être tourmentée par la culpabilité après ce qu'elle avait fait, mais elle se sentit étrangement en paix, comme si justice avait été accomplie. Quand elle se retourna, elle crut voir un reflet turquoise, mais peut-être que ce n'était qu'un reflet de lumière dans la fenêtre. Au revoir chuchota-t-elle et elle ferma la porte C'était presque disparu La fille au père livre 1 écrit par Blake Pierce narré par Soraya Garay